Dans la collection Lire audio classique, Lettres choisie de Jean-Jacques Rousseau, 1728-1778 Première partie, Jeunesse irrégulière, 1728-1739 À un cousin à Turin, vers 1728 Mon cher cousin Quoique tu m'écrives de la façon que tu écrirais à un étranger, je ne laisse pas de te répondre à notre manière accoutumée. C'est donc sur ce ton que je tâcherai de t'éclaircir sur les reproches que tu me fais dans ta lettre. Premièrement, tu peux voir, par la preuve de mon amitié, que tu tiens de ma main et que je te prie de ne jamais abandonner jusqu'à ce que je t'en puisse donner une plus évidente et sensible, si mon amitié est une amitié fardée et peu sincère, comme tu me le marques, fondée sur ce que je n'ai fait paraître aucun des plaisirs de ton éloignement. Mais tu sais toi-même que nous en étions demeurés d'accord ensemble et que tu m'y avais sollicité afin de me mettre à couvert du soupçon d'être d'intelligence avec toi. Et Dieu sait si je n'ai pas cherché avec tout l'empressement possible à apprendre ton adresse à Turin, afin de t'y faire tenir un papier parlant venant de ma main, par la voix d'un de mes amis, qui est parti pour ce pays là, il y a quelques jours, qui est le fils de monsieur Dacier. Je te prie de le bien saluer de ma part, si tu le vois. Par tout cela, tu peux connaître le caractère maudit de celui qui t'a incité à me faire ces reproches, parce que je n'avais pas voulu le défrayer de la moitié du port de ta lettre. Je lui ai rendu l'argent des médailles. Il a bien eu l'insolence de demander à ma tante Fazi l'argent que tu lui devais et a écrit deux fois à ton père pour ce sujet. Au reste, c'est le garçon le plus intéressé que j'ai vu de ma vie, jusqu'à me mettre en trousse ses amis, des fils de boucher, pour se faire payer dix sous de Genève que je lui devais, et encore lorsqu'il savait que je n'avais point d'argent. À ce portrait reconnaît l'indignité de son procédé. Et reviens des faux préjugés où tu es tombé à mon égard. Quoi qu'il en soit, mon cher cousin, sois persuadé que rien ne saurait jamais m'empêcher d'être à ton égard le plus fidèle ami qui fut jamais. À Mademoiselle Giraud à Annecy, Neuchâtel, été 1731. serai bien certain de votre adresse et que vous m'apprendrez que vous avez reçu cette lettre je ne doute pas que vous n'ayez conservé pour moi cette même bonté que vous m'avez témoignée jusqu'à présent ainsi je vous écris avec une certaine confiance que vous me pardonnerez je crois facilement ici répondons à votre chère lettre je suis très sensible à la bonté que veut bien avoir madame de varins de se ressouvenir encore de moi cette nouvelle m'a donné une consolation que je ne saurais vous exprimer, et je vous proteste que jamais rien ne m'a plus violemment affligé que d'avoir encouru sa disgrâce. J'ai eu déjà l'honneur de vous dire, mademoiselle, que j'ignorais les fautes qui avaient pu me rendre coupable à ses yeux mais jusqu'ici la crainte de lui déplaire m'a empêché de prendre la liberté de lui écrire pour me justifier, ou du moins pour obtenir par mes soumissions un pardon qui serait dû à ma profonde douleur, quand bien même j'aurais commis les plus grands crimes. Aujourd'hui, mademoiselle, si vous voulez bien vous employer pour moi, l'occasion est favorable, et à votre sollicitation, elle m'accordera sans doute la permission de lui écrire, car c'est une hardiesse que je n'oserais prendre de moi-même. C'était me faire injure que demander si je voulais qu'elle eût mon adresse. Puis-je avoir rien de caché pour une personne à qui je dois tout Je ne mange pas un morceau de pain que je ne reçoive d'elle. Sans les soins de cette charitable dame, je serais peut-être déjà mort de faim, et si j'ai vécu jusqu'à présent, c'est aux dépens d'une science qu'elle m'a procurée. Hâtez-vous donc, mademoiselle, je vous en supplie, intercédez pour moi, et tâchez de m'obtenir la permission de me justifier. J'ai bien reçu votre lettre datée du 21 novembre, adressée à Lausanne. J'avais donné de bons ordres, et elle me fut envoyée sur-le-champ. L'aimable demoiselle de Graffenried est toujours dans mon cœur. Et je brûle d'impatience de recevoir de ses nouvelles. Faites-moi le plaisir de lui demander, au cas qu'elle soit encore à Annecy, si elle agréerait une lettre de ma main. Comme j'ai ordre de m'informer de monsieur Venture, je serais fort aise d'apprendre où il est actuellement. Il a eu grand tort de ne point écrire à monsieur son père qui est fort en peine de lui. J'ai promis de donner de ses nouvelles dès que j'en saurai moi-même. Si cela ne vous fait pas de la peine, accordez-moi la grâce de me dire s'il est toujours à Annecy. Et son adresse à peu près. Comme j'ai beaucoup travaillé depuis mon départ d'auprès de vous, si vous agréez pour vous désennuyer que je vous envoie quelques-unes de mes pièces, je le ferai avec joie, toutefois sous le sceau du secret car je n'ai pas encore assez de vanité pour vouloir porter le nom d'auteur. Il faut auparavant que je sois parvenu à un degré qui puisse me faire soutenir ce titre avec honneur. Ce que je vous offre, c'est pour vous dédommager en quelque sorte de la compote de curiosité qui n'est pas encore mangeable. Passons à votre dernier article qui est le plus important. Je commencerai par vous dire qu'il n'était point nécessaire de préambule pour me faire agréer vos sages avis. Je les recevrai toujours en bonne part et avec beaucoup de respect, et je tâcherai d'en profiter. Quant à celui que vous me donnez, soyez persuadée, mademoiselle, que ma religion est profondément gravée dans mon âme, et que rien n'est capable de l'en effacer. Je ne veux pas ici me donner beaucoup de gloire de la constance avec laquelle j'ai refusé de retourner chez moi. Je n'aime pas prôner des dehors de piété qui souvent trompent les yeux et ont de tout autre motif que ceux que montrent les apparences. Enfin, mademoiselle, ce n'est pas par divertissement que j'ai changé de nom et de patrie et que je risque à chaque instant d'être regardé comme un fourbe et peut-être un espion. Finissons une trop longue lettre. C'est assez vous ennuyer. Je vous prie de vouloir bien m'honorer d'une prompte réponse, parce que je ne ferai peut-être pas long séjour dans cette ville. Mes affaires sont ici dans une fort mauvaise crise. Je suis déjà fort endetté et je n'ai qu'une seule écolière tout le monde est en campagne je ne sais comment sortir je ne sais comment rester parce que je ne sais point faire de bassesse gardez-vous de rien dire de ceci à madame de varins j'aimerais mieux la mort qu'elle crue que je suis dans la moindre indigence et vous-même tâchez de l'oublier car je me repens de vous l'avoir dit adieu mademoiselle je suis toujours avec autant d'estime que de reconnaissance à isaac rousseau son père à Nyon. Neuchâtel, été 1731. Et mon cher père, malgré les tristes assurances que vous m'avez données que vous ne me regardiez plus pour votre fils, j'ose encore recourir à vous comme au meilleur de tous les pères, et quels que soient les justes sujets de haine que vous devez avoir contre moi, le titre de fils malheureux et repentant les efface dans votre cœur et la douleur vive et sincère que je ressens d'avoir si mal usé de votre tendresse paternelle me remet dans les droits que le sang me donne auprès de vous. Vous êtes toujours mon cher père, et quand je ne ressentirai que le seul poids de mes fautes, je suis assez puni dès que je suis criminel. Mais, hélas, il est bien encore d'autres motifs qui feraient changer votre colère en une compassion légitime si vous en étiez pleinement instruit. Les infortunes qui m'accablent depuis longtemps n'expliquent trop les crimes dont je me sens coupable, et s'il est vrai que les fautes sont énormes, la pénitence les surpasse encore. Triste sort que celui d'avoir le cœur plein d'amertume, et de n'oser même exhaler sa douleur par quelques soupirs, Triste sort que d'être abandonné d'un père dont on aurait pu faire les délices et la consolation, mais plus triste sort de se voir forcé d'être à jamais ingrat et malheureux en même temps, et d'être obligé de traîner par toute la terre sa misère et ses remords. Vos yeux se chargeraient de larmes si vous connaissiez à fond ma véritable situation. L'indignation ferait bientôt place à la pitié et vous ne pourriez vous empêcher de ressentir quelque peine des malheurs dont je me vois accablé. Je n'aurais osé me donner la liberté de vous écrire si je n'y avais été forcé par une nécessité indispensable. J'ai longtemps balancé dans la crainte de vous offenser encore davantage, mais enfin j'ai cru que dans la triste situation où je me trouve, j'aurais été doublement coupable si je n'avais fait tous mes efforts pour obtenir de vous des secours qui me sont absolument nécessaires. Quoi que j'ai à craindre de votre refus, je ne m'en flatte pas moins de quelque espérance. Je n'ai point oublié que vous êtes bon père, et je sais que vous êtes assez généreux pour faire du bien aux malheureux, indépendamment des lois du sang et de la nature qui ne s'effacent jamais dans les grandes âmes. Enfin, mon cher père, il faut vous l'avouer, je suis à Neuchâtel dans une misère où mon imprudence a donné lieu. » Comme je n'avais point de talent que la musique qui pût me tirer d'affaire, je crus que je ferais bien de la mettre en usage si je le pouvais, et voyant bien que je n'en savais pas encore assez pour l'exercer dans des pays catholiques, je m'arrêtai à Lausanne où j'ai enseigné pendant quelques mois, d'où, étant venu à Neuchâtel, je me vis dans peu de temps par des gains assez considérables, joints à une conduite fort réglée, en état d'acquitter quelques dettes que j'avais à Lausanne. Mais étant sorti d'ici un peu inconsidérément après une longue suite d'aventures que je me réserve l'honneur de vous détailler de bouche, si vous voulez bien le permettre, je suis revenu. Mais le chagrin que je puis dire sans vanité que mes écolières conçurent de mon départ a bien été payé à mon retour par les témoignages que j'en reçois qu'elles ne veulent plus recommencer, de façon que, privé de secours nécessaire, j'ai contracté ici quelques dettes qui m'empêchent d'en sortir avec honneur et qui... C'est à de pareils bienfaits que le ciel réserve ses récompenses. Que ferais je si vous me refusiez? De quelle confusion ne serais je pas couvert? Faudrait il, après avoir si longtemps vécu sans reproche, malgré les vicissitudes d'une fortune inconstante, que je déshonore aujourd'hui mon nom par une indignité? Non, mon cher père, j'en suis sûr, vous ne le permettrez pas. Ne craignez point que je vous fasse jamais une semblable prière. Je puis enfin, par le moyen d'une science que je cultive incessamment, vivre sans le secours d'autrui. Je sens combien il pèse d'avoir obligation aux étrangers, et je me vois en état, après des soins continuels, de subsister par moi-même. Je ne rentrerai plus, et ce métier est indigne de moi. Si j'ai refusé plusieurs fois une fortune éclatante, c'est que j'estime mieux une obscure liberté qu'un esclavage brillant. Mes souhaits vont être accomplis et j'espère que je vais bientôt jouir d'un sort doux et tranquille, sans dépendre que de moi-même et d'un père dont je veux toujours respecter et suivre les ordres. Pour me voir en cet état, il ne me manque que d'être hors d'ici où je me suis témérairement engagé. J'attends ce dernier bienfait de votre main avec une entière confiance. Honorez-moi, mon cher père, d'une réponse de votre main ce sera la première lettre que j'aurai reçue de vous dès ma sortie de Genève. Accordez moi le plaisir de baiser au moins ces chers caractères. Euh, faites moi la grâce de vous hâter, car je suis dans une crise très pressante. Mon adresse est ici jointe. Vous devinerez aisément les raisons qui m'ont fait prendre un nom supposé. Votre prudente discrétion ne vous permettra pas de rendre publique cette lettre, ni de la montrer à personne qu'à ma chère mère, que j'assure de mes très humbles respects et que je supplie les larmes aux yeux de vouloir bien me pardonner mes fautes et me rendre sa chère tendresse. Pour vous, mon cher père, je n'aurai jamais de repos que je n'aie mérité le retour de la vôtre et je me flatte que le jour viendra encore où vous vous ferez un vrai plaisir de m'avouer pour mon cher père votre très humble et très obéissant serviteur et fils à madame la baronne de Varins à Chambéry à Besançon le 29 juin 1733 madame j'ai l'honneur de vous écrire dès le lendemain de mon arrivée à Besançon J'y ai trouvé bien des nouvelles auxquelles je ne m'étais pas attendu et qui m'ont fait plaisir en quelque façon. Je suis allé ce matin faire ma révérence à Monsieur l'Abbé Blanchard, qui nous a donné à dîner à Monsieur le Comte de Saint-Rieux et à moi. Il m'a dit qu'il partirait dans un mois pour Paris, où il va remplir le quartier de Monsieur Campra, qui est malade, et comme il est fort âgé, Monsieur Blanchard se flatte de lui succéder en la charge d'intendant, premier maître de quartier de la musique de la chambre du roi et conseiller de Sa Majesté en ses conseils. Il m'a donné sa parole d'honneur qu'au cas que ce projet lui réussisse, il me procurera un appointement dans la chapelle ou dans la chambre du roi au bout du terme de deux ans le plus tard. Ce sont là des postes brillants et lucratifs qu'on ne peut assez ménager. Aussi l'ai je très fortement remercié, avec assurance que je n'épargnerai rien pour m'avancer de plus en plus dans la composition pour laquelle il m'a trouvé un talent merveilleux. Je lui rends à souper ce soir avec deux ou trois officiers du régiment du roi avec qui j'ai fait connaissance au concert. Monsieur m. l'abbé Blanchard m'a prié d'y chanter un récit de basse taille que ces messieurs ont eu la complaisance d'applaudir, aussi bien qu'un duo de et b que j'ai chanté avec M. Duroncel, fameux haute-contre de l'ancienne opéra de Lyon. C'est beaucoup faire pour un lendemain d'arrivée. J'ai donc résolu de retourner dans quelques jours à Chambéry, où je m'amuserai à enseigner pendant le terme de deux années, ce qui m'aidera toujours à me fortifier, ne voulant pas m'arrêter ici ni passer pour un simple musicien, ce qui me ferait quelques jours un tort considérable. Ayez la bonté de m'écrire, Madame, si j'y serai reçu avec plaisir et si l'on m'y donnera des écoliers. » Je me suis fourni de quantités de papiers et de pièces nouvelles d'un goût charmant et qui sûrement ne sont pas connues à Chambéry. Mais je vous avoue que je ne me soucie guère de partir que je ne s'achèverai si l'on se réjouira de m'avoir. J'ai trop de délicatesse pour y aller autrement. Ce serait un trésor et en même temps un miracle de voir un musicien en sa voix. Je n'ose ni ne puis me flatter d'être de ce nombre. Mais en ce cas, je me vante toujours de produire en autrui ce que je ne suis pas moi-même. D'ailleurs tous ceux qui se serviront de mes principes auront lieu de s'en louer, et vous en particulier, madame, si vous voulez bien encore prendre la peine de les pratiquer quelquefois. Faites moi l'honneur de me répondre par le premier ordinaire, et au cas que vous voyez qu'il n'y ait point de débouché pour moi à Chambéry, vous aurez s'il vous plaît la bonté de me le marquer. Et comme il me reste encore deux parties à choisir, je prendrai la liberté de consulter le secours de vos sages avis sur l'option d'aller à Paris en droiture avec l'abbé Blanchard, ou à solheur auprès de monsieur l'ambassadeur. Cependant, comme ce sont là de ces coups de parti qu'il n'est pas bon de précipiter, je serais bien aise de ne rien presser encore. Tout bien examiné, je ne me repens point d'avoir fait ce petit voyage qui pourra dans la suite m'être d'une grande utilité. J'attends, madame, avec soumission, l'honneur de vos ordres, et suis, avec une respectueuse considération, madame, Etc. À Madame la Baronne de Varins, à Chambéry. À Cluse, le 31 août 1733. Madame, l'on dit bien vrai que brebis galeuse le loup la mange. J'étais à Genève, gai comme un pinson, pensant terminer quelque chose avec mon père, et d'ici avoir maintes occasions de vous assurer de mes profonds respects. Mais, madame, l'imagination court bien vite, tandis que la réalité ne la suit pas toujours. Mon père n'est point venu, et m'a écrit, comme dit le révérend père, une lettre de vrai gascon. Et qui pisait, c'est que c'est bien moi qui le gasconne. Vous en verrez l'original dans peu. Ainsi, rien de fait ni à faire pour le présent, suivant toutes les apparences. L'autre cas est que je n'ai pu avoir l'honneur de vous écrire aussitôt que je l'aurais voulu, manque d'occasions qui sont bien claires dans ce pays-ci et seulement une fois la semaine. Si je voulais, madame, vous marquer en détail toutes les honnêtetés que j'ai reçues du révérend père et que j'en reçois actuellement tous les jours, j'aurais pour longtemps à dire. Ce qui est rangé sur le papier par une main aussi mauvaise que la mienne ennuie quelquefois le bénévole lecteur. Mais, madame, j'espère me bien dédommager de ce silence gênant la première fois que j'aurai l'honneur de vous faire la révérence. Tout cela est parfaitement bien jusqu'ici. Mais sa révérence, ne vous en déplaise, me retient ici un peu plus longtemps qu'il ne faudrait, par une espèce de force, un peu de sa part, un peu de la mienne. De sa part, par les manières obligeantes et les caresses avec lesquelles il a la bonté de m'arrêter, et de la mienne parce que j'ai de la peine à me détacher d'une personne qui me témoigne tant de bonté. Enfin, madame, je suis ici le mieux du monde, et le révérend père m'a dit qu'il ne prétend que je m'en aille que quand il lui plaira, et que je serai bien et dûment lactifié. Je fais, madame, bien des voeux pour la conservation de votre santé. Dieu veuille vous la rendre aussi bonne que je le souhaite et que je l'en prie. J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, madame, votre très humble et très obéissant serviteur. À Isaac Rousseau, à Nyon, Chambéry, fin de Monsieur et très cher père, dans la dernière lettre que vous avez eu la bonté de m'écrire, le cinquième courant, vous m'exhortez à vous communiquer mes vues au sujet d'un établissement. Je vous prie de m'excuser si j'ai tardé de vous répondre. La matière est importante. Il m'a fallu quelques jours pour faire mes réflexions et pour les rédiger clairement afin de vous en faire part. Je conviens avec vous, mon très cher père, de la nécessité de faire à bonne heure le choix d'un établissement et de s'occuper à suivre utilement ce choix. J'avais déjà compris cela, mais je me suis toujours vu jusqu'ici hors de la supposition absolument nécessaire en pareil cas, et sans laquelle l'homme ne peut agir, qui est la possibilité. Supposons par exemple que mon génie eût tourné naturellement du côté de l'étude, soit pour l'église, soit pour le barreau. Il est clair qu'il eût fallu des secours d'argent, soit pour ma nourriture, soit pour mon habillement, soit encore pour fournir aux frais des études. Mettons le cas aussi que le commerce eût été mon but. Outre mon entretien, il eût fallu payer un apprentissage, et enfin trouver un fonds convenable pour m'établir honnêtement. Les frais n'eussent pas été beaucoup moindres pour le choix d'un métier. Il est vrai que je savais déjà quelque chose de celui de graveur, mais outre qu'il n'a jamais été de mon goût, il est certain que je n'en savais pas à beaucoup près assez pour pouvoir me soutenir, et qu'aucun maître ne m'eût reçu sans payer les frais d'un assujettissement. Voilà, suivant mon sentiment, le cas de tous les différents établissements dont je pouvais raisonnablement faire choix. Je vous laisse juger à vous-même, mon cher père, s'il a dépendu de moi d'en remplir les conditions. Ce que je viens de dire ne peut regarder que le passé. À l'âge où je suis, il est trop tard pour penser à tout cela, et telle est ma misérable condition que quand j'aurais pu prendre un parti solide, tous les secours nécessaires m'ont manqué, et quand j'ai lieu d'espérer de me voir quelque avance, le temps de l'enfance, ce temps précieux d'apprendre, se trouve écoulé sans retour. Voyons donc à présent ce qu'il conviendrait de faire dans la situation où je me trouve. En premier lieu, je puis pratiquer la musique que je sais assez passablement pour cela. Secondement, un peu de talent que j'ai pour l'écriture, je parle du style, pourrait m'aider à trouver un emploi de secrétaire chez quelques grands seigneurs. Enfin, je pourrais, dans quelques années, et avec un peu plus d'expérience, servir de gouverneur à des jeunes gens de qualité. Quant au premier article, je me suis toujours assez applaudi du bonheur que j'ai eu de faire quelques progrès dans la musique pour laquelle on me flatte d'un goût assez délicat, et voici, mon cher père, comment j'ai raisonné. La musique est un art de peu de difficulté dans sa pratique, c'est-à-dire que partout pays on trouve facilement à l'exercer les hommes sont faits de manière qu'ils préfèrent assez souvent l'agréable à l'utile. Il faut les prendre par leurs faible et en profiter quand on peut le faire sans injustice. Or, qu'y a-t-il de plus juste que de tirer une contribution honnête de son travail La musique est donc de tous les talents que je puis avoir, non pas peut-être à la vérité celui qui me fait le plus d'honneur, mais au moins le plus sûr quant à la facilité car vous conviendrez qu'on ne trouve pas toujours aisément l'entrée des maisons considérables, et pendant qu'on cherche et qu'on se donne des mouvements, il faut vivre, et la musique peut toujours servir d'expectative. Voilà la manière dont j'ai considéré que la musique pourrait m'être utile. Voici pour le second article qui regarde le poste de secrétaire. Comme je me suis déjà trouvé dans le cas, je connais à peu près les divers talents qui sont nécessaires dans cet emploi, un style clair et bien intelligible, beaucoup d'exactitude et de fidélité, de la prudence à manier les affaires qui peuvent être de notre ressort, et par-dessus tout un secret inviolable. Avec ces qualités, on peut faire un bon secrétaire. Je puis me flatter d'en posséder quelques-unes, je travaille chaque jour à l'acquisition des autres, et je n'épargnerai rien pour y réussir. Enfin, quant au poste de gouverneur d'un jeune seigneur, je vous avoue naturellement que c'est l'état pour lequel je me sens un peu de prédilection. Vous allez d'abord être surpris. Différez s'il vous plaît un instant de décider. Il ne faut pas que vous pensiez, mon cher père, que je me sois donné si parfaitement à la musique, que j'ai négligé toute autre espèce de travail. La bonté qu'a eue Madame de Varas de m'accorder chez elle un asile m'a procuré l'avantage de pouvoir employer mon temps utilement et c'est ce que j'ai fait avec assez de soin jusqu'ici. D'abord, je me suis fait un système d'études que j'ai divisé en deux chefs principaux. Le premier comprend tout ce qui sert à éclairer l'esprit et à l'orner de connaissances utiles et agréables, et l'autre renferme les moyens de former le cœur à la sagesse et à la vertu. Madame de Varins a la bonté de me fournir des livres, et j'ai tâché de faire le plus de progrès qu'il était possible, et de diviser mon temps de manière que rien n'en restât inutile. De plus, tout le monde peut me rendre justice sur ma conduite. Je chéris les bonnes mœurs, et je ne crois pas que personne ait rien à me reprocher de considérable contre leur pureté. J'ai de la religion, et je crains Dieu. D'ailleurs, sujet à d'extrêmes faiblesses et rempli de défauts plus qu'aucun autre homme au monde, je sens combien il y a de vices à corriger chez moi. Mais enfin, les jeunes gens seraient heureux s'ils tombaient toujours entre les mains de personnes qui eussent autant que moi de haine pour le vice et d'amour pour la vertu. Ainsi, pour ce qui regarde les sciences et les belles lettres, je crois d'en savoir autant qu'il en faut pour l'instruction d'un jeune gentilhomme, outre que ce n'est point précisément l'office d'un gouverneur d'en donner les leçons, mais seulement d'avoir attention qu'elles se prennent avec fruit. Et effectivement, il est nécessaire qu'il sache sur toutes les matières plus que son élève ne doit apprendre. Je n'ai rien à répondre à l'objection qu'on me peut faire sur l'irrégularité de ma conduite passée. Comme elle n'est pas excusable, je ne prétends pas l'excuser. Aussi, mon cher père, je vous ai dit d'abord que ce ne serait que dans quelques années et avec plus d'expérience que j'oserais entreprendre de me charger de la conduite de quelqu'un. C'est que j'ai dessein de me corriger entièrement et que j'espère d'y réussir. Sur tout ce que je viens de dire, euh, vous pourrez encore m'opposer que ce ne sont point des établissements solides, principalement quant au premier et troisième article, et là-dessus je vous prie de considérer que je ne vous les propose point comme tels, mais seulement comme les uniques ressources où je puisse recourir dans la situation où je me trouve, en cas que les secours présents vinssent à me manquer. Mais il est temps de vous développer mes véritables idées et d'en venir à la conclusion. Vous n'ignorez pas, mon cher père, les obligations infinies que j'ai à Madame de Varins. C'est sa charité qui m'a tiré plusieurs fois de la misère et qui s'est constamment attachée depuis huit ans à pourvoir à tous mes besoins et même bien au-delà du nécessaire. La bonté qu'elle a eue de me retirer dans sa maison, de me fournir des livres, de me payer des maîtres et par-dessus tout, ses excellentes instructions et son exemple édifiant m'ont procuré les moyens d'une heureuse éducation et de tourner au bien mes mœurs alors encore indécises. Il n'est pas besoin que je relève ici la grandeur de tous ces bienfaits, la simple exposition que j'en fais à vos yeux suffit pour vous en faire sentir le prix au premier coup d'œil. Jugez, mon cher père, de tout ce qui doit se passer dans un cœur bien fait en reconnaissance de tout cela. La mienne est sans borne, et voyez jusqu'où s'étend mon bonheur. Je n'ai de moyens pour la manifester que le seul qui peut me rendre parfaitement heureux. J'ai donc dessein de supplier madame de Varins, de vouloir bien agréer que je passe le reste de mes jours auprès d'elle, et que je lui rende, jusqu'à la fin de ma vie, tous les services qui seront en mon pouvoir. Je veux lui faire goûter, autant qu'il dépendra de moi, par mon attachement à elle et par la sagesse et la régularité de ma conduite, les fruits des soins et des peines qu'elle s'est donnés pour moi. Ce n'est point une manière frivole de lui témoigner ma reconnaissance, cette sage et aimable dame a des sentiments aussi beaux pour trouver de quoi se payer de ses bienfaits par ses bienfaits mêmes et par l'hommage continuel d'un cœur plein de zèle, d'estime, d'attachement et de respect pour elle. J'ai lieu d'espérer, mon cher Père, que vous approuverez ma résolution et que vous la seconderez de tout votre pouvoir. Par là, toutes difficultés sont levées. L'établissement est tout fait, assurément le plus solide et le plus heureux qui puisse être au monde, puisque, outre les avantages qui en résultent en ma faveur, il est fondé de part et d'autre sur la bonté du cœur et sur la vertu. Au reste, je ne prétends pas trouver par là un prétexte honnête de vivre dans la fainéantise et dans l'oisiveté. Il est vrai que le vide de mes occupations journalières est grand, mais je l'ai entièrement consacré à l'étude, et madame de Varins pourra me rendre la justice que j'ai suivi assez régulièrement ce plan, et jusqu'à présent elle ne s'est plainte que de l'excès. Il n'est pas à craindre que mon goût change, L'étude a un charme qui fait que quand on l'a une fois goûté, on ne peut plus s'en détacher, et, et d'autre part, l'objet en est si beau qu'il n'y a personne qui puisse blâmer ceux qui sont assez heureux pour y trouver du goût et pour s'en occuper. Voilà, mon cher père, l'exposition de mes vues. Je vous supplie très humblement d'y donner votre approbation, d'écrire à Madame de Varens et de vous employer auprès d'elle pour les faire réussir. J'ai lieu d'espérer que vos démarches ne seront pas infructueuses et qu'elles tourneront à notre commune satisfaction. Je suis etc. À Mademoiselle Labussière, à Lyon, 1735-1742. J'ose à peine vous avouer, Mademoiselle, la circonstance à laquelle je dois le bonheur de vous avoir vue et le tourment de vous aimer. Le hasard a commencé, l'amour a terminé cet événement. Mais que dis-je le hasard? Non, l'amour a tout opéré. Dès l'instant que votre voix enchantresse s'est fait entendre, c'est par lui qu'elle a pénétré jusqu'à mon cœur. C'est lui qui a excité en moi la plus indiscrète curiosité. C'est lui qui a étalé à mes avides regards des trésors dangereux. C'est lui qui, depuis les bains du vin de ce mois, trouble ma raison. C'est lui qui m'a dicté cette lettre. Mais pourquoi vous taire ici le plus redoutable de ces pièges, et celui sans lequel j'eusse peut-être échappé à tous les autres Je ne craindrais point de le dire, mademoiselle. Il doit nous faire honneur à tous les deux. Oui, ce sont moins ses yeux, dont la douceur égale la vivacité. C'est moins cette fraîcheur et ces lisses répandues avec tant de profusion sur toute votre personne. C'est moins cette taille svelte et légère qui ne perd rien par la nudité. C'est moins cette forme élégante, ces gracieux contours qu'il me serait aussi téméraire de vouloir décrire qu'il me l'a été d'oser les voir. C'est moins, dis-je, le détail et l'ensemble de tant de charmes qui m'ont séduit que cette rougeur aimable fille de la pudeur et de l'ingénuité dont j'aperçus votre front se couvrir dès que je m'offris à votre vue, après vous avoir démasqué trop malignement mon indiscrétion par un couplet que je chante. Dieu, que vous étiez belle, tant il est vrai que la vertu est le fond le plus séduisant de la beauté. Que ne puis je vous rendre tout ce qui se passa dans mon âme à l'aspect de votre confusion. Je n'eus pas le courage de vous fixer longtemps. Il me sembla, dans vos yeux, que vous me reprochiez d'avoir ajusté la méchanceté à la licence, et ces reproches me paraissaient moins inspirés par le courroux que par le regret de me trouver si coupable. Oh, comme je détestais ma cruelle plaisanterie! Combien je me serais estimé heureux de pouvoir me précipiter à vos genoux pour en obtenir le pardon! Et maintenant encore, presque sans espoir d'être à jamais connu de vous, je sens qu'il importe à ma tranquillité que vous me l'accordiez. La crainte d'aggraver mes torts en paraissant jouir des alarmes de votre pudeur m'éloigna promptement du rivage. Je me retirai tout rempli de vos traits, désolé d'avoir pu vous causer quelque peine, de ne vous laisser qu'une opinion désavantageuse de moi, et désespéré de ne voir aucun moyen de réparer ma faute. Cette cruelle idée m'a tellement bourrelé l'esprit que vingt fois j'ai formé le dessein de vous voir et de vous parler. Vingt fois ma timidité m'a retenu. C'est de votre bouche même que j'ai appris votre nom, tandis que vous accoutumiez le jeune enfant qui vous accompagnait au bain à le répéter en diverses manières et avec les plus agréables diminutifs. Mon oreille attentive se prêtait aux douces inflexions de votre voix et ce nom chéri se gravait en lettres de feu dans ma mémoire. Quelques indices m'ont informé de votre demeure. J'ai osé porter mes pas de ce côté. Mon cœur sut bientôt vous démêler parmi les personnes avec qui vous étiez. J'étais déjà troublé, mais dans l'instant où vos yeux rencontrèrent les miens, mes genoux chancelants, ma vue obscurcie, me permirent à peine de poursuivre mon chemin. Vous n'avez jamais sans doute éprouvé ces effets, votre jeunesse, votre innocence, mensonge de surgarant, puissiez-vous toujours les ignorer Mais heureux celui pour qui vous les ressentirez Un peu remis de mon émotion, je revins sur mes pas, à peu près comme l'aiguille aimantée revient sur son pôle. Vous aviez prévu sûrement ce retour vos beaux yeux obstinément baissés rendirent encore vaine cette fois l'espérance que j'avais d'y lire mon pardon enfin découragé par mille obstacles par mille inconvénients que ma raison s'était forcée de grossir et de multiplier j'ai voulu vous oublier j'ai tout tenté pour vous chasser de mon cœur efforts impuissants je me sens capable de souffrir tout hors l'idée de votre haine et malheureusement elle m'occupe sans cesse Tranquillisez-moi sur cet article, mademoiselle, ne fût-ce que par pitié. Je ne me crois point en droit d'exiger d'autres sentiments, mais celui ci est innocent, il est l'apanage des belles âmes, il ne peut manquer d'avoir une place dans la vôtre. Quant à moi, peu vous importe quel sentiment m'anime, votre délicatesse n'en reçoit aucune atteinte. Si c'est un crime, il est à moi seul, et vous n'y avez d'autre part que le talent involontaire d'être aimable. Permettez-moi cependant de vous donner un avis. N'allez plus au bain, mademoiselle. Ou prenez y plus de précautions. À la fin vous ne seriez plus tout à fait si excusable. Vous ne manqueriez pas de curieux indiscrets dévoués à un sort pareil au mien. Il y aurait de l'inhumanité à abuser de la magie de vos attraits pour allumer dans le cœur de ces malheureux des incendies que vous ne voudriez point éteindre. Ce sont de ces manèges barbares dont il faut abandonner l'usage aux coquettes. Je vous crois trop sensible pour l'être. Je ne me ferai point connaître, mademoiselle. Cette réserve est aussi essentielle pour moi qu'elle l'est peu pour vous. Si toutefois, ce dont je ne me flatte point, vous preniez à moi un intérêt assez vif pour le désirer, nous aviserions au moyen de vous satisfaire d'une manière décente et sans manquer à ce que vous devez à vous-même. Je ne vous demande ici qu'un mot de consolation. Une simple assurance que vous ne m'en voulez pas. C'est peu de choses pour vous. Ce sera tout pour moi. Je suis, mademoiselle, l'homme qui vous aime et qui vous estime le plus. Il vous sera facile de me témoigner vos dispositions par la même voie qui vous fait parvenir cette lettre. Soyez assurés du secret et de la discrétion des personnes. À Madame de Varin, à Chambéry. À Grenoble, le 13 septembre 1737. Madame, je suis ici depuis deux jours. On ne peut être plus satisfait d'une ville que je le suis de celle-ci. On m'y a marqué tant d'amitié et d'empressement que je croyais en sortant de Chambéry me trouver dans un nouveau monde. Hier, M. Micou me donna à dîner avec plusieurs de ses amis, et le soir après la comédie, j'allais souper avec le bonhomme Lagère. Je n'ai vu ni Madame la Présidente, ni Madame des ni M. le président de Tancin. Ce seigneur est en campagne. Je n'ai pas laissé de remettre la lettre à ces gens. Pour madame de Bardonanche, je me suis présenté plusieurs fois sans pouvoir lui faire la révérence. J'ai fait remettre la lettre, et j'y dois dîner ce matin, où j'apprendrai des nouvelles de madame Desbasses. et Il faut parler de monsieur de Lorme. J'ai eu l'honneur, madame, de lui remettre votre lettre en main propre. Ce monsieur, s'excusant sur l'absence de monsieur l'évêque, m'offrit un écu de six francs. Je l'acceptai par timidité, mais je crus devoir en faire présent au portier. Je ne sais si j'ai bien fait, mais il faudra que mon âme change de moule avant que de me résoudre à faire autrement. J'ose croire que la vôtre ne m'en démentira pas. J'ai eu le bonheur de trouver pour Montpellier, en droiture, une chaise de retour. J'en profiterai. Le marché s'est fait par l'entremise d'un ami, et il ne m'en coûte pour la voiture qu'un louis de 24 francs. Je partirai demain matin. Je suis mortifié, madame, que ce soit sans recevoir d'ici de vos nouvelles, mais ce n'est pas une occasion à négliger. Si vous avez, madame, des lettres à m'envoyer, je crois qu'on pourrait les faire tenir à monsieur Micou, qui les ferait partir ensuite pour Montpellier, à l'adresse de monsieur Lazerne. Vous pouvez aussi les envoyer de Chambéry en droiture. Ayez la bonté de voir ce qui convient le mieux. Pour moi, je n'en sais rien du tout. Il me fâche extrêmement d'avoir été contraint de partir sans faire la révérence à monsieur le marquis d'Entremont, et lui présenter mes très humbles actions de grâce. Oserais-je, madame, vous prier de vouloir suppléer à cela? Comme je compte de pouvoir être à Montpellier mercredi au soir, le 18 du courant, je pourrai donc, madame, recevoir de vos précieuses nouvelles dans le cours de la semaine prochaine, si vous preniez la peine d'écrire dimanche ou lundi matin. Vous m'accorderez, s'il vous plaît, la faveur de croire que mon empressement jusqu'à ce temps-là ira jusqu'à l'inquiétude. Permettez encore, madame, que je prenne la liberté de vous recommander le soin de votre santé. N'êtes-vous pas, ma chère maman N'ai-je pas le droit d'y prendre le plus vif intérêt et n'avez vous pas besoin qu'on vous excite à tout moment à y donner plus d'attention? La mienne fut fort dérangée hier soir au spectacle. On représenta Alzire. Mal à la vérité, mais je ne laissais pas d'y être ému jusqu'à perdre la respiration. Mes palpitations augmentèrent étonnamment, et je crains de m'en sentir quelque temps. Pourquoi, madame, y a t-il des cœurs sensibles au grand, au sublime, au pathétique, pendant que d'autres ne semblent faits que pour ramper dans la bassesse de leurs sentiments. La fortune semble faire à tout cela une espèce de compensation. À force d'élever ceux ci, elle cherche à les mettre de niveau avec la grandeur des autres. Y réussit elle ou non? Le public et vous, madame, n'en serez pas du même avis. Cet accident m'a forcé de renoncer désormais au tragique jusqu'au rétablissement de ma santé. Me voilà privé d'un plaisir qui m'a bien coûté des larmes dans ma vie. J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, madame. etc. À Madame de Varens à Chambéry, à Montpellier, le 23 octobre 1737. Madame, je ne me sers point de la voie indiquée de M. Barillot parce que c'est faire le tour de l'école. Vos lettres et les miennes passant toutes par Lyon, il faudrait avoir une adresse à Lyon. Voici un mois passé de mon arrivée à Montpellier sans avoir pu recevoir aucune nouvelle de votre part, quoique j'aie écrit plusieurs fois et par différentes voies. Vous pouvez croire que je ne suis pas fort tranquille et que ma situation n'est pas des plus gracieuses. Je vous proteste cependant, madame, avec la plus parfaite sincérité, que ma plus grande inquiétude vient de la crainte qu'il ne vous soit arrivé quelque accident. Je vous écris cette ordinaire-ci par trois différentes voix, savoir par messieurs Vepre, monsieur Micou et en droiture. Il est impossible qu'une de ces trois lettres ne vous parvienne. Aussi j'en attends la réponse dans trois semaines au plus tard. Passez ce temps-là, si je n'ai point de nouvelles, je serai contraint de partir dans le dernier désordre et de me rendre à Chambéry comme je pourrai. Ce soir, la poste doit arriver et il se peut qu'il y aura quelques lettres pour moi. Peut-être n'avez-vous pas fait mettre les vôtres à la poste les jours qu'il fallait Car j'aurais réponse depuis quinze jours si les lettres avaient fait chemin dans leur temps. Vos lettres doivent passer par Lyon pour venir ici. Ainsi, c'est les mercredis et samedis de bon matin qu'elles doivent être mises à la poste. « Je vous avais donné précédemment l'adresse de ma pension. Il faudrait peut-être mieux les adresser en droiture où je suis logé, parce que je suis sûr de les recevoir exactement. C'est chez M. Marcellon, huissier de la Bourse, en rue Basse, proche du palais. J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, madame, etc. »« Si vous avez quelque chose à m'envoyer par la voie des marchands de Lyon et que vous écriviez par exemple à M. Vepre par le même ordinaire qu'à moi, » Je dois, s'ils sont exacts, recevoir leurs lettres en même temps que la vôtre. J'allais fermer ma lettre quand j'ai reçu la vôtre, madame du douzième du courant. Je crois n'avoir pas mérité les reproches que vous m'y faites sur mon peu d'exactitude. Depuis mon départ de Chambéry, je n'ai point passé de semaines sans vous écrire. Du reste, je me rends justice, et quoique peut-être il dût me paraître un peu dur que la première lettre que j'ai l'honneur de recevoir de vous ne soit pleine que de reproches, je conviens. Que je les mérite tous. Que voulez-vous, Madame, que je vous dise Quand j'agis, je crois faire les plus belles choses du monde, et puis il se trouve au bout que ce ne sont que sottises. Je le reconnais parfaitement bien de moi-même. Il faudrait tâcher de se rédire contre sa bêtise à l'avenir et faire plus d'attention sur sa conduite. C'est ce que je vous promets, avec une forte envie de l'exécuter. Après cela, si quelque retour d'amour-propre voulait encore m'engager à tenter quelque voie de justification, je réserve à traiter cela de bouche avec vous, madame, non pas s'il vous plaît à la Saint-Jean, mais à la fin du mois de janvier ou au commencement du suivant. Quant à la lettre de monsieur Arnaud, vous savez madame mieux que moi ce qui me convient en fait de recommandation. Je vois bien que vous vous imaginez que, parce que je suis à Montpellier, je puis voir les choses de plus près et juger de ce qu'il y a à faire. Mais, madame, je vous prie d'être bien persuadée que, hors ma pension et l'hôte de ma chambre, il m'est impossible de faire aucune liaison, ni de connaître le terrain le moins du monde à Montpellier, jusqu'à ce qu'on m'ait procuré quelque arme pour forcer les barricades que l'humeur inaccessible des particuliers et de toute la nation en général met à l'entrée de leur maison. Oh! Qu'on a une idée bien fausse du caractère languedocien, et surtout les habitants de Montpellier à l'égard de l'étranger. Mais pour revenir, les recommandations dont j'aurais besoin sont de toutes les espèces. Premièrement, pour la noblesse et les gens en place, il me serait très avantageux d'être présenté à quelqu'un de cette classe pour tâcher à me faire connaître et à faire usage du peu de talent que j'ai, ou du moins à me donner quelque ouvrage qui pût m'être utile dans la suite, en temps et lieu. En second lieu, pour les commerçants, afin de trouver quelques voies de communication plus courtes et plus faciles, et pour mille autres avantages que vous savez que l'on tire de ces connaissances-là. Troisièmement, parmi les gens de lettres, savants, professeurs, par les lumières qu'on peut acquérir avec eux et les progrès qu'on y pourrait faire. Enfin, généralement, pour toutes les personnes de mérite avec lesquelles on peut du moins lier une honnête société. Apprendre quelque chose et couler quelques heures prises sous la plus rude et la plus ennuyeuse solitude du monde. J'ai l'honneur de vous écrire cela, madame, et non à monsieur l'abbé Arnaud, parce qu'ayant la lettre, vous verrez mieux ce qu'il y aura à répondre, et que si vous voulez bien vous donner cette peine vous-même, cela fera encore un meilleur effet en ma faveur. Vous faites, madame, un détail si riant de ma situation à Montpellier qu'en vérité, je ne saurais mieux rectifier ce qui peut n'être pas conforme au vrai qu'en vous priant de prendre tout le contre-pied je m'étendrai plus au long dans ma prochaine sur l'espèce de vie que je mène ici quant à vous madame plus à dieu que le récit de votre situation fût moins véridique hélas je ne puis pour le présent faire que des vœux ardents pour l'adoucissement de votre sort il serait trop envié s'il était conforme à celui que vous méritez je n'ose espérer le rétablissement de ma santé, car elle est encore plus en désordre que quand je suis parti de Chambéry. Mais, madame, si Dieu daignait me la rendre, il est sûr que je n'en ferai d'autre usage qu'à tâcher de vous soulager de vos soins et à vous seconder en bon et tendre fils et en élève reconnaissant. Vous m'exhortez, madame, à rester ici jusqu'à la Saint-Jean. Je ne le ferai pas quand on m'y couvrirait d'or. Je ne sache pas d'avoir vu de ma vie un pays plus antipathique à mon goût que celui-ci, ni de séjour plus ennuyeux, plus maussade que celui de Montpellier. Je sais bien que vous ne me croirez point. Vous êtes encore rempli des belles idées que ceux qui y ont été attrapés en ont répandues dehors pour attraper les autres. Cependant, Madame, je vous réserve une relation de Montpellier qui vous fera toucher les choses au doigt et à l'œil. Je vous attends là pour vous étonner. Pour ma santé, il n'est pas étonnant qu'elle ne s'y remette pas. Premièrement, les aliments n'y valent rien, mais rien, je dis rien et je ne badine point. Le vin y est trop violent et incommode toujours. Le pain y est passable, à la vérité, mais il n'y a ni bœuf, ni vache, ni beurre. On n'y mange que de mauvais moutons et du poisson de mer en abondance, le tout toujours apprêté à l'huile puante. Il vous serait impossible de goûter de la soupe ou des ragoûts qu'on nous sert à ma pension sans vomir. Je ne veux pas m'arrêter davantage là-dessus, car si je vous disais les choses précisément comme elles sont, vous seriez en peine de moi bien plus que je ne le mérite. En second lieu, l'air ne me convient pas. Autre paradoxe encore plus incroyable que les précédents, c'est pourtant la vérité. On ne saurait disconvenir que l'air de Montpellier ne soit fort pur et en hiver assez doux. Cependant, le voisinage de la mer le rend à craindre pour tous ceux qui sont attaqués de la poitrine. Aussi y voit on beaucoup de physique. Un certain vent, qu'on appelle ici le marin, amène de temps en temps des brouillards épais et froids, chargés de particules salines et âcres, qui sont fort dangereuses. Aussi j'ai ici des rhumes, des maux de gorge, et des esquinancies plus souvent qu'à Chambéry. Ne parlons plus de cela quant à présent, car si j'en disais davantage, vous n'en croiriez pas un mot. Je puis pourtant protester que je n'ai dit que la vérité. Enfin, un troisième article, c'est la cherté. Pour cela, je ne m'y arrêterai pas parce que je vous en ai parlé précédemment et que je me prépare à parler de tout cela plus au long en traitant de Montpellier. Il suffit de vous dire qu'avec l'argent comptant que j'ai apporté et les deux cents livres que vous avez eu la bonté de me promettre... Il s'en faudrait beaucoup qu'il m'en restât actuellement autant devant moi pour prendre l'avance, comme vous dites, qu'il en faudrait laisser en arrière pour boucher les trous. Je n'ai encore pu donner un sou à la maîtresse de pension, ni pour le louage de ma chambre. Jugez madame comment me voilà joli garçon. Et pour achever de me peindre, si je suis contraint de mettre quelque chose à la presse, ces honnêtes gens ci ont la charité de ne prendre que douze sols par écu de six francs tous les mois. À la vérité, j'aimerais mieux tout vendre que d'avoir recours à un tel moyen. Cependant, madame, je suis si heureux que personne ne s'est encore avisé de me demander de l'argent, sauf celui qu'il faut donner tous les jours pour les os, bouillons de poulet, purgatif, Ben, Encore ai-je trouvé le secret d'en emprunter pour cela sans gage et sans usure, et cela du premier cancre de la terre. Cela ne pourra pas durer pourtant, d'autant plus que le deuxième mois est commencé depuis hier. Mais je suis tranquille depuis que j'ai reçu de vos nouvelles et que je suis assuré d'être secouru à temps. Pour les commodités, elles sont en abondance. Il n'y a point de bon marchand à Lyon qui ne tire une lettre de change sur Montpellier. Si vous en parlez à M. C., il lui sera de la dernière facilité de faire cela. En tout cas, voici l'adresse d'un que paie un de nos messieurs du Bellet et de la voix duquel on peut se servir. Monsieur Parent, marchand drapier à Lyon, au change. Quant à mes lettres, il vaut mieux les adresser chez M. Barcelon, ou plutôt Marcelon, comme l'adresse est à la première page. On sera plus exact à me les rendre. Il est deux heures après minuit, la plume me tombe des mains. Cependant, je n'ai pas écrit la moitié de ce que j'avais à écrire. La suite de la relation et le reste, etc., sera renvoyée pour lundi prochain. C'est que je ne puis faire mieux, sans quoi, madame, je ne vous imiterai certainement pas à cet égard. En attendant, je m'en rapporte aux précédentes et présente mes respectueuses salutations au révérend père Jésuite, le révérend père Aimet et le révérend père Copier. Je vous prie bien humblement de leur présenter une tasse de chocolat que vous boirez ensemble, s'il vous plaît, à ma santé. Pour moi, je me contente du fumet, car il ne m'en reste pas un misérable morceau. J'ai oublié de finir en parlant de Montpellier et de vous dire que j'ai résolu d'en partir vers la fin de décembre et d'aller prendre le lait d'Annes en Provence, dans un petit endroit fort joli à deux lieux du Saint-Esprit. C'est un air excellent. Il y aura bonne compagnie, avec laquelle j'ai déjà fait connaissance en chemin, et j'espère de n'y être pas tout à fait si chèrement qu'à Montpellier. Je demande votre avis là-dessus. Il faut encore ajouter que c'est faire d'une pierre deux coups, car je me rapproche de deux journées. Je vois, madame, qu'on épargnerait bien des embarras et des frais si l'on faisait écrire par un marchand de Lyon à son correspondant d'ici de me compter de l'argent quand j'en aurais besoin jusqu'à concurrence de la somme destinée, car ces retards me mettent dans de fâcheux embarras et ne vous sont d'aucun avantage. À Monsieur X, vers 1739. Vous voilà donc monsieur déserteur du monde et de ses plaisirs. C'est à votre âge et dans votre situation une métamorphose bien étonnante quand un homme de vingt deux ans, galant, aimable, poli, spirituel comme vous l'êtes, et d'ailleurs point rebuté de la fortune, se détermine à la retraite par simple goût et sans y être excité par quelque mauvais succès dans ses affaires ou dans ses plaisirs. On peut s'assurer qu'un fruit si précieux du bon sens et de la réflexion n'amènera pas après lui de dégoût ni de repentir. Fondé sur cette assurance, j'ose vous faire, à l'égard de votre retraite, un compliment qui ne vous sera pas répété par bien des gens. Je vous en félicite. Sans vouloir trop relever ce qu'il y a de grand et peut-être d'héroïque dans votre résolution, je vous dirai franchement que j'ai souvent regretté qu'un esprit aussi juste et une âme aussi belle que la vôtre ne fût ce fait que pour la galanterie, les cartes et le vin de champagne. Vous étiez né, mon très cher monsieur, pour une meilleure occupation. Le goût un peu passionné mais délicat qui vous entraîne vers les plaisirs vous a bientôt fait démêler la fadeur des plus brillants. Vous éprouverez avec étonnement que les plus simples et les plus modestes n'en ont ni moins d'attrait ni moins de vivacité. Vous connaissez désormais les hommes. Vous n'avez plus besoin de les en voir pour apprendre à les mépriser. Il sera bon maintenant que vous vous consultiez un peu pour savoir à votre tour quelle opinion vous devez avoir de vous-même. Ainsi, en même temps que vous essaierez d'un autre genre de vie, vous ferez en même temps sur votre intérieur un petit examen dont le fruit ne sera pas inutile à votre tranquillité. Je ne voudrais pas, monsieur, que vous donnassiez dans l'excès sans ménagement. Vous n'avez pas sans doute absolument renoncé à la société ni au commerce des hommes. Comme vous vous êtes déterminé de pur choix et sans qu'aucun fâcheux revers vous y ait contraint, vous n'aurez garde d'épouser les fureurs atrabilaires des misanthropes, ennemis mortels du genre humain. Permis à vous de le mépriser à la bonne heure, vous ne serez pas le seul, mais vous devez l'aimer toujours. Les hommes, quoi qu'on dise, sont nos frères, en dépit de nous et d'eux. Frères fort durs à la vérité, mais nous n'en sommes pas moins obligés de remplir à leur égard tous les devoirs qui nous sont imposés. À cela près, il faut avouer qu'on ne peut se dispenser de porter la lanterne dans la quantité pour s'établir un commerce et des liaisons. Et quand malheureusement la lanterne ne montre rien, c'est bien une nécessité de traiter avec soi-même et de se prendre, faute d'autres, pour amis et pour confidents. Mais ce confident et cet ami, il faut aussi un peu le connaître, et savoir comment et jusqu'à quel point on peut se fier à lui, car souvent l'apparence nous trompe, même jusque sur nous mêmes. Or le tumulte des villes et le fracas du grand monde ne sont guère propres à cet examen. Les distractions des objets extérieurs y sont trop longues et trop fréquentes, on ne peut y jouir d'un peu de solitude et de tranquillité. Sauvons nous à la campagne? Allons-y chercher un repos et un contentement que nous n'avons pu trouver au milieu des assemblées et des divertissements. Essayons de ce nouveau genre de vie. Goûtons un peu de ces paisibles douceurs dont Horace, un fin connaisseur s'il en fut, faisait un si grand cas. Voilà, monsieur, comment je soupçonne que vous avez raisonné. À Madame de Varins à Chambéry, Charmette, 18 mars 1739. Ma très chère maman. J'ai reçu comme je le devais le billet que vous m'écrivîtes dimanche dernier, et j'ai convenu sincèrement avec moi même que, puisque vous trouviez que j'avais tort, il fallait que je l'eusse effectivement. Ainsi, sans chercher à chicaner, j'ai fait mes excuses de bon cœur à mon frère, et je vous fais de même ici les miennes très humbles. Je vous assure aussi que j'ai résolu de tourner toujours du bon côté les corrections que vous jugerez à propos de me faire, sur quelque ton qu'il vous plaise de les tourner. Vous m'avez fait dire qu'à l'occasion de vos Pâques, vous voulez bien me pardonner je n'ai garde de prendre la chose au pied de la lettre, et je suis sûr que, quand un cœur comme le vôtre a autant aimé quelqu'un que je me souviens de l'avoir été de vous, il lui est impossible d'en venir jamais à un tel point d'aigreur qu'il faille des motifs de religion pour le réconcilier. Je reçois cela comme une petite mortification que vous m'imposez en me pardonnant, et dont vous savez bien qu'une parfaite connaissance de vos vrais sentiments adoucira l'amertume. Je vous remercie, ma très chère maman, de l'avis que vous m'avez fait donner d'écrire à mon père. Rendez-moi cependant la justice de croire que ce n'est ni par négligence, ni par oubli que j'avais retardé jusqu'à présent. Je pensais qu'il aurait convenu d'attendre la réponse de M. l'abbé Arnaud, afin que si le sujet du mémoire n'avait eu nulle apparence de réussir, comme il est à craindre, je lui eusse passé sous silence ce projet évanoui. Cependant vous m'avez fait faire réflexion que mon délai était appuyé sur une raison trop frivole, et pour réparer la chose le plus tôt qu'il est possible, je vous envoie ma lettre que je vous prie de prendre la peine de lire, de fermer et de faire partir si vous le jugez à propos. Il n'est pas nécessaire, je crois, de vous assurer que je languis depuis longtemps dans l'impatience de vous revoir. Songez, ma très chère maman, qu'il y a un mois, et peut-être de là, que je suis privé de ce bonheur. Je suis du plus profond du cœur et avec les sentiments du fils le plus tendre, ma très chère maman, etc. Deuxième partie Les années difficiles, 1740-1750 à madame la baronne de Varins, à chambéry à lyon le er mai 1740. madame et très chère maman me voici enfin arrivé chez m de mably je ne vous dirai point encore précisément quelle y sera ma situation mais ce qu'il m'en paraît déjà n'a rien de rebutant Monsieur de Mably est un très honnête homme à qui un grand usage du monde, de la cour et de ses plaisirs ont appris à philosopher de bonheur, et qui n'a pas été fâché de me trouver des sentiments assez concordants aux siens. Jusqu'ici, je n'ai qu'à me louer des égards qu'il m'a témoignés. Il entend que j'en agisse chez lui sans façon et que je ne sois gêné en rien. Vous devez juger qu'étant ainsi livré à ma discrétion, je m'en accorderai en effet d'autant moins de liberté. Les bonnes manières peuvent tout sur moi, et si M. de Mably ne se dément point, il peut être assuré que mon cœur lui sera sincèrement attaché. Mais vous m'avez appris à ne pas courir à l'extrême sur de premières apparences, et à ne jamais compter plus qu'il ne faut sur ce qui dépend de la fantaisie des hommes. Savoir à présent comment on pense sur mon compte, c'est ce qui n'est pas entièrement en mon pouvoir ma timidité ordinaire m'ayant fait jouer le premier jour un assez sot personnage et si m de mably avait été savoyard il aurait porté là-dessus son redoutable jugement sans espérance d'appel je ne sais si au travers de cet air embarrassé il a démêlé en moi quelque chose de bon ce qu'il y a de sûr c'est que ses manières polies et engageantes m'ont entièrement rassurée et qu'il ne tient plus qu'à moi de me montrer à lui tel que je suis il écrit au révérend père de Lacoste, qui ne manquera point de vous communiquer sa lettre. Vous pourrez juger là-dessus de ce qu'il pense sur mon compte. J'ose vous prier, ma très chère maman, de vouloir bien faire agréer mes très humbles respects au révérend père jésuite. Quant à mon petit élève, on ne saurait lui refuser d'être très aimable mais je ne saurais encore vous dire s'il aura le cœur également bon, parce que souvent ce qui paraît à cet âge des signes de méchanceté n'en sont en effet que de vivacité et d'étourderie. J'ai rempli ma lettre de minutie, mais daignez ma très chère maman m'éclaircir au plus tôt de ce qui m'est uniquement important, je veux dire de votre santé et de la prospérité de vos affaires, que font les charmettes, les kikis et tout ce qui m'intéresse tant. Mon adresse est chez Monsieur de Mably, prévôt général du Lyonnais, rue Saint-Dominique. J'ai l'honneur d'être avec une vive reconnaissance et un profond respect, Madame, votre très humble et très obéissant serviteur et fils. À Monsieur Dupin. Paris, le 10 avril 1743. Monsieur. Permettez, monsieur, que j'emploie les moments qu'une légère indisposition m'empêche de passer près de vous, à vous ouvrir mon cœur de rechef. Je sais combien ces sortes de récidives sont importunes, mais je crois nécessaire d'y venir encore une fois pour n'y revenir jamais. Je ne suis ni assez aveugle ni assez vain pour m'imaginer que j'eusse jamais pu être d'une grande utilité dans votre maison. Quand madame Dupin et vous, monsieur, m'avez fait l'honneur de m'y admettre, j'ai senti que vous ne le faisiez que par un principe d'humanité, et j'ai proportionné ma reconnaissance à ce sentiment. Vous pouviez cependant avoir fondé sur mes faibles talents quelques espérances, que j'ai sans doute mal soutenues. Ce sont les indices qu'il me paraît d'en avoir et la justice que je suis forcé de me rendre qui m'engage aujourd'hui à m'en éclaircir avec vous. Je vois, Monsieur, que vous en conservez toujours la même bonté pour moi, mais dans les cœurs aussi bien faits que le vôtre, les bontés ne tirent guère à conséquence pour le mérite de celui qui les reçoit. Il est étrange qu'avec tant de zèle et de bonne volonté, je ne me sois montré jusqu'à présent que par des endroits défectueux. Sans doute il n'est pas possible que l'amour pour le bien n'ait produit en moi quelques bonnes qualités. Malheureusement, elles y sont offusquées par tant de défauts qu'elles ne sauraient percer les premières, et l'impression étant déjà faite quand elle viendrait apparaître, c'est rarement par elle qu'on peut juger de moi. Euh, quoi qu'il en soit, le dégoût visible de madame Dupin m'annonce un malheur qui me cause plus d'affliction que d'étonnement, et je dois prévoir le vôtre assez tôt pour ne pas vous laisser le désagrément de me le témoigner, ni à moi le désespoir de déplaire à un bienfaiteur pour qui tous les mouvements de mon cœur sont des sentiments de respect, de reconnaissance et d'attachement. Je m'étais flatté, monsieur, du bonheur de vous appartenir pour le reste de mes jours, et je puis jurer que cette idée est la première et le seul vrai sentiment de plaisir qui m'est touché. L'espoir de mériter votre estime et votre affection, joint à l'amour de l'étude et du repos, m'en faisait un avenir charmant, auquel j'ai sacrifié avec joie toute autre vue. Bien loin de prétendre me prévaloir aujourd'hui d'un tel sacrifice, je conviens le premier, que je ne suis point digne de ce bonheur. Et quand je n'aurai contre moi d'autres motifs d'exclusion que l'ardeur avec laquelle je le souhaite, je connais trop la triste fatalité qui me poursuit pour compter sur un bien capable de me rendre heureux. Un triste penchant à prévoir tous les malheurs que je crains et une cruelle exactitude du sort à justifier toutes mes craintes me rend le mien comme assuré. Et c'est pour vous supplier de confirmer ou de détruire ce doute une bonne fois que j'ai l'honneur de vous écrire aujourd'hui. Je n'ai ni assez de talent, ni assez de mérite, ni assez de sagesse pour me croire digne de votre protection et de vos bontés. À prendre les choses dans ce sens-là, j'ai cent motifs de craindre, et je n'en ai aucune de me rassurer. Si Madame Dupin et vous, Monsieur, n'êtes qu'équitables, mon sort n'est plus douteux, et il en faudra subir la triste influence. Sur ce pied-là, mon parti est pris, et, sans faire le désespérer, vous connaîtrez par ma conduite si mon zèle était sincère, et si j'ai porté dans l'avenir des vues au-delà de votre disgrâce. J'espère que vous conviendrez aussi que la durée des bienfaits ne fixe point en moi celle du respect et de la reconnaissance. Rempli de travers et de défauts, je sais du moins les haïr. Il est des retours sur nos fautes qui valent mieux que de n'en avoir point commis. Si les erreurs d'un tel caractère vous paraissent dignes de quelque indulgence, j'implore la vôtre et celle de Madame Dupin. Il suffira que ma vue ne lui soit pas odieuse à un certain point pour que je travaille avec succès à devenir supportable. Mes talents sont extrêmement bornés, je l'avoue, mais il est d'autres endroits par lesquels un honnête homme peut se faire aimer, estimer et même se rendre utile. J'en ferai mon unique étude. Sans ambition, sans intérêt et sans désir de briller, je ne ferai consister mon bonheur qu'à mériter votre confiance, vos bontés et celle de madame Dupin. Je ne vous dis rien qui ne soit une image fidèle de ce qui se passe au fond de mon âme, jugez moi là-dessus et daignez m'accorder un mot de réponse. J'ai l'honneur d'être, avec respect, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. À M. de Conzié, comte des Charmettes, à Venise, ce 21 septembre 1743. Je connais si bien, monsieur, votre générosité naturelle, que je ne doute point que vous ne preniez part à mon désespoir, et que vous ne me fassiez la grâce de me tirer de l'état affreux d'incertitude où je suis. Je compte pour rien les infirmités qui me rendent mourant au prix de la douleur de n'avoir aucune nouvelle de madame de Varins, quoique je lui ai écrit, depuis que je suis ici, par une infinité de voix différentes. Vous connaissez les liens de reconnaissance et d'amour filial qui m'attachent à elle. Jugez du regret que j'aurais à mourir sans recevoir de ces nouvelles. Ce n'est pas sans doute de vous faire un grand éloge que de vous avouer, monsieur, que je n'ai trouvé que vous seul à Chambéry capable de rendre un service par pure générosité mais c'est du moins à vous parler suivant mes vrais sentiments que de vous dire que vous êtes l'homme du monde de qui j'aimerais mieux en recevoir. Rendez moi, monsieur, celui de me donner des nouvelles de ma pauvre maman. Ne me déguisez rien, monsieur, je vous en supplie. Je m'attends à tout. Je souffre déjà tous les maux que je peux prévoir, et la pire de toutes les nouvelles pour moi, c'est de n'en recevoir aucune. Vous aurez la bonté, monsieur, de m'adresser votre lettre sous le pli de quelques correspondants de Genève pour qu'il me la fasse parvenir, car elle ne viendrait pas en droiture. Je passais en poste à Milan, ce qui me priva du plaisir de rendre moi-même votre lettre que j'ai fait parvenir depuis. J'ai appris que votre aimable marquise s'est remariée il y a quelque temps. Adieu, monsieur, puisqu'il faut mourir tout de bon, c'est à présent qu'il faut être philosophe. Je vous dirai une autre fois quel est le genre de philosophie que je pratique. J'ai l'honneur d'être avec le plus sincère et le plus parfait attachement, Monsieur, etc. À Monsieur Duteil, à Paris, le 11 octobre 1744. Monsieur, voici la dernière fois que je prendrai la liberté de vous écrire, jusqu'à ce qu'il vous ait plu de me faire parvenir vos ordres. Je sens combien mes lettres doivent vous importuner et ce n'est qu'avec beaucoup de respect que je me vois réduit à un métier si contraire à mon caractère. Mais, monsieur, je ne pouvais, en conséquence de ce que j'ai eu l'honneur de vous écrire précédemment, me dispenser de vous informer de mon arrivée à Paris. Et, de plus, je reconnais que le ton de mes lettres demanderait bien des explications, que la discrétion m'oblige cependant d'abandonner en partie, et que je réduirais à une seule exposition du motif qui me les a fait écrire. Si vous daignez, monsieur, faire prendre quelques explications sur ma conduite et sur mon caractère, soit à Venise, soit à Gênes, où j'ai l'honneur d'être connu de monsieur de Joinville, soit à Lyon, soit à Genève, ma patrie, j'espère que vous n'apprendrez rien qui n'aggrave l'injustice des violences dont monsieur le comte de Montaigu a jugé à propos de m'accabler. Les traitements qu'il m'a faits sont de ceux contre lesquels un honnête homme ne se précautionne point. Avec les devoirs que je me suis imposés et les sentiments dont je me suis nourri, je m'étais cru assez supérieur à de semblables accidents pour n'avoir point à chercher dans mes principes de règles de conduite en de pareils cas. Le zèle et l'exactitude avec lesquels je me suis acquitté de l'emploi que Son Excellence m'avait confié n'ont pas dû m'inspirer plus de défiance. Peut-être serais-je assez heureux pour que vous en puissiez entendre parler par quelqu'un qui soit en état d'en juger et qui n'ait point d'intérêt à me calomnier. S'il m'est donc arrivé, monsieur, de vous écrire quelque chose d'irrégulier, je vous supplie de le pardonner aux troubles affreux et au désespoir où m'ont jeté de si étranges traitements. Qu'en est-on rien de plus triste pour un honnête homme que de se voir indignement diffamé aux yeux du public et, en péril de sa propre vie, sans ombre de prétexte pour de misérables discussions d'intérêts, sans qu'il soit permis de se défendre, ni possible de se justifier? Inutilement ai-je senti que je m'allais donner du ridicule, et que l'inférieur aurait toujours tort vis-à-vis -vis de son supérieur, puisque je n'ai point vu d'autre voie que de justes et respectueuses représentations pour soutenir mon honneur outragé. Ce ne sont point les traitements de M. le comte de Montaigu qui me touchent en eux-mêmes. J'ai lieu de ne le pas croire assez connaisseur en mérite pour faire un cas infini de son estime. Mais, monsieur. Que pensera le public qui, content de juger sur les apparences, se donne rarement la peine d'examiner si celui qu'on maltraite l'a mérité C'est aux personnes qui aiment l'équité et qui sont en droit d'approfondir les choses, de réparer en cela l'injustice du public, et d'y rétablir l'honneur d'un honnête homme qui compte sa vie pour rien quand il a perdu sa réputation. Rien n'est si simple que cette discussion à mon égard. S'agit-il de l'intérêt le compte que j'aurai l'honneur de vous remettre écrit de la propre main de monsieur le comte de Montaigu est un témoignage sans réplique qui ne fera pas honneur à sa bonne foi. S'agit-il de l'honneur Tout Venise a vu avec indignation les traitements honteux dont il m'a accablé. Je suis déjà instruit de quelle couleur Son Excellence sait peindre les personnes qu'elle a prises en haine. Si donc on l'en croit sur sa parole, je ne doute point à la vérité que je ne sois perdu et déshonoré mais qu'on daigne prendre quelques informations et vérifier les choses, et j'ose croire que M. le comte de Montaigu m'aura sans y penser rendu service en me faisant connaître. Je ne prétends point, monsieur, exiger de satisfaction de monsieur l'ambassadeur. Je n'ignore pas, quelque juste qu'elle fût, les raisons qui doivent s'y opposer. Je ne demande que d'être puni rigoureusement si je suis coupable mais si je ne le suis point, et que vous trouviez mon caractère digne de votre estime, et mon sort de quelque pitié, j'ose implorer, monsieur, votre protection, et quelques marques de bonté de votre part qui puissent me réhabiliter aux yeux du public. Peut-être y regagnerais je plus que je n'aurais perdu, mais je sens que le zèle qui me porterait à m'en rendre digne laisserait un jour en doute si vous avez exercé envers moi plus de générosité que de justice. J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. À monsieur de Voltaire, à Paris, le 11 novembre 1745. Monsieur, il y a quinze ans que je travaille pour me rendre digne de vos regards et des soins dont vous favorisez les jeunes muses en qui vous découvrez quelques talents. Mais pour avoir fait la musique d'un opéra, je me trouve, je ne sais comment, métamorphosé en musicien. C'est monsieur en cette qualité que monsieur le duc de Richelieu m'a chargé de scènes dont vous avez lié vos divertissements de la princesse de Navarre. Il a même exigé que je fisse dans les canevas les changements nécessaires pour les rendre convenables à votre nouveau sujet. J'ai fait mes respectueuses représentations. Monsieur le duc a insisté. J'ai obéi. C'est le seul parti qui convienne à l'état de ma fortune. Monsieur Ballot s'est chargé de vous communiquer ces changements. Je me suis attaché à les réduire au moins de mots qu'il était possible. C'est le seul mérite que je pouvais leur donner. Je vous supplie, monsieur, de vouloir les examiner, ou plutôt d'en substituer de plus dignes de la place qu'ils doivent occuper. Quant au récitatif, J'espère aussi, monsieur, que vous voudrez bien les juger avant l'exécution et m'indiquer les endroits où je me serai écarté du beau et du vrai, c'est-à-dire de votre pensée. Quel que soit pour moi le succès de ces faibles essais, ils me seront toujours glorieux s'ils me procurent l'honneur d'être connu de vous et de vous montrer l'admiration et le profond respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. À M. Altuna, à Paris le 30 juin 1748. Votre lettre du 7 de ce mois, mon cher et bon ami, est venue bien à propos pour ma consolation au milieu des terribles attaques d'un mal dont je n'avais pas eu jusqu'ici le moindre soupçon. Une violente rétention d'urine a été suivie d'une indication déclarée de gravelle et enfin d'une colique néphrétique la plus effroyable qu'on ait jamais sentie. Après quinze jours de souffrance, grâce à Dieu, les douleurs sont un peu calmées. Mais la difficulté d'uriner continue toujours au même degré. J'ai pris les bains, qui ne m'ont rien fait, et après avoir employé tous les secours de l'art qui étaient à la portée de mes facultés, j'ai trouvé que la patience et la résignation étaient les seuls remèdes à mon mal, de manière que je vais recommencer de sortir et de vaquer à mes affaires, me remettant du reste à la volonté de Dieu. Je tire un favorable augure des épreuves amères qu'il lui plaît de m'envoyer. J'ai tant mérité de châtiment que je n'ai pas le droit de me plaindre de ceci, et puisqu'il commence par la justice, j'espère qu'il finira par la miséricorde. À quelle rude épreuve mettez-vous ma vertu, me rappelant sans cesse un projet qui faisait l'espoir de ma vie? J'aurais besoin plus que jamais de son exécution pour la consolation de mon pauvre cœur accablé d'amertume et pour le repos que demanderaient mes infirmités, mais, quoi qu'il en puisse arriver, je n'achèterai point ma félicité par un lâche déguisement envers mon ami. Vous connaissez mes sentiments sur un certain point. Ils sont invariables, car ils sont fondés sur l'évidence et sur la démonstration qui sont, quelques doctrines qu'on embrasse, les seules armes qu'on ait pour l'établir. Car, Quoique ma foi m'apprenne bien des choses qui sont au dessus de ma raison, c'est premièrement ma raison qui m'a forcé de me soumettre à ma foi. Mais n'entrons point dans ces discussions. Vous pouvez parler, et je ne le puis pas, cela met trop davantage de votre côté. D'ailleurs, vous cherchez, par zèle, à me tirer de mon état, et je me fais un devoir de vous laisser dans le vôtre comme avantageux pour la paix de votre esprit et également bon pour votre salut éternel, si vous y êtes de bonne foi et que vous vous conduisez toujours selon les divins et sublimes principes du christianisme. Vous voyez donc que, de toute manière, la discussion sur ce point là est interdite entre nous. Du reste, ayez assez bonne opinion du cœur et de l'esprit de votre ami pour croire qu'il a réfléchi plus d'une fois sur les lieux communs que vous lui alléguez, et que sa morale de principe, si ce n'est celle de sa conduite, n'est pas inférieure à la vôtre, ni certainement moins agréable à Dieu. Je suis donc intraitable sur ce point. » les plus affreuses douleurs, ni les approches de la mort, n'ont rien qui ne m'affermisse, rien qui ne me console dans l'espérance d'un bonheur éternel que j'espère partager avec vous dans le sein de mon Créateur. Je m'aperçois que je ne vous parle que de moi, mais puisque les grandes peines sont de mon côté, il est juste que la plus grande effusion de cœur y soit aussi. Et du reste, soyez certain que vos peines et vos plaisirs seront toujours les miens. Je fais des vœux ardents pour que le plus heureux mariage assure votre félicité. J'attends vos commissions pour y joindre les livres que vous me demandez et je vous embrasse. Adieu. À Monsieur de Valmalette, maître d'hôtel du roi à Paris, fragment vers 1749-1751. quel long et injuste silence mon cher ami mais j'étais malade et paresseux aujourd'hui que je suis malade paresseux et libre aujourd'hui que je me fous de tous vous autres gens de cour aujourd'hui que tous les rois de la terre avec toutes leurs morgues tous leurs titres et tout leur or ne me feraient pas faire un pas à monsieur de Voltaire à Paris le 30 janvier 1750. Monsieur, un Rousseau se déclara autrefois votre ennemi de peur de se reconnaître votre inférieur. Un autre Rousseau, ne pouvant approcher du premier par le génie, veut imiter ses mauvais procédés. Je porte le même nom qu'eux, mais n'ayant ni les talents de l'un ni la suffisance de l'autre, je suis encore moins capable d'avoir leur tort envers vous. Je consens bien de vivre inconnu, mais non déshonoré, et je croirais l'être si j'avais manqué au respect que vous doivent tous les gens de l'être et qu'ont pour vous tous ceux qui en méritent eux mêmes. Je ne veux point m'étendre sur ce sujet, ni enfreindre même avec vous la loi que je me suis imposée de ne jamais louer personne en face. Mais, monsieur, « Je prendrai la liberté de vous dire que vous avez mal jugé d'un homme de bien en le croyant capable de payer d'ingratitude et d'arrogance la bonté et l'honnêteté dont vous avez usé envers lui au sujet des fêtes de Ramir. »« Je n'ai point oublié la lettre dont vous m'honorate dans cette occasion. Elle a achevé de me convaincre que, malgré de vaines calomnies, vous êtes véritablement le protecteur des talents naissants qui en ont besoin. » C'est en faveur de ceux dont je faisais l'essai que vous daignâtes me promettre de l'amitié. Leur sort fut malheureux et j'aurais dû m'y attendre. Un solitaire qui ne sait point parler, un homme timide, découragé, n'ose se présenter à vous quel eût été mon titre. Ce ne fut point le zèle qui me manqua, mais l'orgueil, et, n'osant m'offrir à vos yeux, j'attendis du temps quelque occasion favorable pour vous témoigner mon respect et ma reconnaissance. Depuis ce jour, j'ai renoncé aux lettres et à la fantaisie d'acquérir de la réputation, et, désespérant d'y arriver comme vous à force de génie, j'ai dédaigné de tenter, comme les hommes vulgaires, d'y parvenir à force de manège. Mais je ne renoncerai jamais à mon admiration pour vos ouvrages. Vous avez peint l'amitié et toutes les vertus en homme qui les connaît et les aime. J'ai entendu murmurer l'envie, j'ai méprisé ses clameurs, et j'ai dit sans crainte de me tromper ces écrits qui m'élèvent l'âme et m'enflamment le courage ne sont point d'un homme indifférent pour la vertu. Vous n'avez pas non plus bien jugé d'un républicain puisque j'étais connu de vous pour tel. J'adore la liberté. Je déteste également la domination et la servitude et ne veux en imposer à personne. De tels sentiments sympathisent mal avec l'insolence. Elle est plus propre à des esclaves ou à des hommes plus vils encore, à de petits auteurs jaloux des grands. Je vous proteste donc, monsieur, que non seulement Rousseau de Genève n'a point tenu les discours que vous lui avez attribués, mais qu'il est incapable d'en tenir de pareils. Je ne me flatte point de mériter l'honneur d'être connu de vous, mais si ce bonheur m'arrive, ce ne sera, j'espère, que par des endroits dignes de votre estime. J'ai l'honneur d'être avec un profond respect, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. Troisième partie La Réforme intérieure, 1751-1756 À Madame de Franqueuil. à Paris, le 20 avril 1751. Oui, Madame, j'ai mis mes enfants aux enfants-trouvés. J'ai chargé de leur entretien l'établissement fait pour cela. Si ma misère et mes maux m'ôtent le pouvoir de remplir un soin si cher, c'est un malheur dont il faut me plaindre, et non un crime à me reprocher. Je leur dois la subsistance, je la leur ai procurée meilleure ou plus sûre au moins que je n'aurais pu la leur donner moi-même. Cet article est avant tout. Ensuite vient la déclaration de leur mère qu'il ne faut pas déshonorer. Vous connaissez ma situation. Je gagne au jour la journée, mon pain, avec assez de peine. Comment nourrirais-je encore une famille si j'étais contraint de recourir au métier d'auteur, comment les soucis domestiques et les tracas des enfants me laisseraient ils dans mon grenier la tranquillité d'esprit nécessaire pour faire un travail lucratif? Les écrits que dicte la faim ne rapportent guère, et cette ressource est bientôt épuisée. Il faudrait donc recourir aux protections, à l'intrigue, au manège, briguer quelque vil emploi, le faire valoir par les moyens ordinaires. Autrement, il ne me nourrira pas, et me sera bientôt ôté. Enfin, me livrer moi-même à toutes les infamies pour lesquelles je suis pénétré d'une si juste horreur. Nourrir, moi, mes enfants et leur mère, du sang des misérables Non, madame, il vaut mieux qu'ils soient orphelins que d'avoir pour père un fripon. Accablé d'une maladie douloureuse et mortelle, je ne puis espérer encore une longue vie. Quand je pourrais entretenir de mon vivant ces infortunés destinés à souffrir un jour, ils paieraient chèrement l'avantage d'avoir été tenus un peu plus délicatement qu'ils ne pourront l'être où ils sont. Leur mère, victime de mon zèle indiscret, chargée de sa propre honte et de ses propres besoins, presque aussi valétudinaire et encore moins en état de les nourrir que moi, sera forcée de les abandonner à eux-mêmes. Et je ne vois pour eux que l'alternative de se faire décrotteur ou bandit, ce qui revient bientôt au même. Si du moins leur état était légitime, ils pourraient trouver plus aisément des ressources. Ayant apporté à la fois le déshonneur de leur naissance et celui de leur misère, que deviendront-ils? Que ne me suis-je marié, me direz-vous Demandez à vos injustes lois, madame. Il ne me convenait pas de contracter un engagement éternel, et jamais on ne me prouvera qu'aucun devoir m'y oblige. Ce qu'il y a de certain, c'est que je n'en ai rien fait et que je n'en veux rien faire. Il ne faut pas faire des enfants quand on ne peut pas les nourrir. Pardonnez-moi, madame, la nature veut qu'on en fasse, puisque la terre produit de quoi nourrir tout le monde. Mais c'est l'état des riches, c'est votre état qui vole au mien le pain de mes enfants. La nature veut aussi qu'on pourvoie à leur subsistance voilà ce que j'ai fait. S'il n'existait pas pour eux un asile, je ferais mon devoir et me résoudrais à mourir de faim moi même plutôt que de ne pas les nourrir. Ce mot d'enfant trouvé, vous en imposerait il? Comme si l'on trouvait ses enfants dans les rues, exposés à périr si le hasard ne les sauve? Soyez sûr que vous n'auriez pas plus d'horreur que moi pour l'indigne père qui pourrait se résoudre à cette barbarie. Elle est trop loin de mon cœur pour que je daigne m'en justifier. Il y a des règles établies. Informez-vous de ce qu'elles sont, et vous saurez que les enfants ne sortent des mains de la sage-femme que pour passer dans celles d'une nourrice. Je sais que ces enfants ne sont pas élevés délicatement. Tant mieux pour eux, ils en deviennent plus robustes, on ne leur donne rien de superflu, mais ils ont le nécessaire, on n'en fait pas des messieurs, mais des paysans ou des ouvriers. Je ne vois rien dans cette manière de les élever dont je ne fisse choix pour les miens quand j'en serai le maître. Je ne les préparerai point par la mollesse aux maladies que donnent la fatigue et les intempéries de l'air à ceux qui n'y sont pas faits. Ils ne sauraient ni danser ni monter à cheval, mais ils auraient de bonnes jambes infatigables. Je n'en ferai ni des auteurs, ni des gens de bureau. Je ne les exercerai point à manier la plume, mais la charrue, la lime ou le rabot, instruments qui font mener une vie saine, laborieuse, innocente, dont on n'abuse jamais pour mal faire et qui n'attire point d'ennemis en faisant bien. C'est à cela qu'ils sont destinés. Par la rustique éducation qu'on leur donne, ils seront plus heureux que leurs pères. Je suis privé du plaisir de les voir et je n'ai jamais savouré la douceur des embrassements paternels. Hélas, je vous l'ai déjà dit, je ne vois là que de quoi me plaindre, et je les délivre de la misère à mes dépens. Ainsi voulait Platon que tous les enfants fussent élevés dans sa république, que chacun restât inconnu à son père, et que tous fussent les enfants de l'État. Mais cette éducation est vile et basse. Voilà le grand crime. Il vous en impose comme aux autres. Et vous ne voyez pas que, suivant toujours les préjugés du monde, vous prenez pour le déshonneur du vice ce qui n'est que celui de la pauvreté. À Madame la Marquise de Créqui, à Paris le 9 octobre 1751. Je me flattais, Madame, d'avoir une âme à l'épreuve des louanges. La lettre dont vous m'avez honoré m'apprend à compter moins sur moi-même, et s'il faut que je vous voie, voilà d'autres raisons d'y compter beaucoup moins encore. J'obéirai toutefois, car c'est à vous qu'il appartient d'apprivoiser les monstres. Je me rendrai donc à vos ordres, madame, le jour qu'il vous plaira de me prescrire. Je sais que M. d'Alembert a l'honneur de vous faire sa cour. Sa présence ne me chassera point, mais ne trouvez pas mauvais, je vous supplie, que tout autre tiers me fasse disparaître. Je suis avec un profond respect, Madame, votre très humble et très obéissant serviteur. À Madame la Marquise de Créqui, Paris ce samedi, vers 1752. J'ai travaillé huit jours, Madame, c'est-à-dire huit matinées. Pour vivre, il faut que je gagne quarante sols par jour. Ce sont donc seize francs qui me sont dus, et dont je prie votre exactitude de différer le paiement jusqu'à mon retour de la campagne. Je n'ai point oublié votre ordre. Mais, monsieur l'ambassadeur est pressé, et vous m'avez dit vous-même que je pouvais également faire à loisir ma traduction sur la copie. À mon retour de Passy, j'aurai l'honneur de vous voir. Le copiste recevra son paiement. Jean-Jacques recevra, puisqu'il le faut, les compliments que vous lui destinez. Et nous ferons sur l'honneur que veut me faire monsieur l'ambassadeur tout ce qu'il plaira à lui et à vous. À Madame de Varins, née baronne de la Tour, à Chambéry, à Paris le 13 février 1753. Vous trouverez si joint ma chère maman, une lettre de change de 240 livres. Mon cœur s'afflige également de la petitesse de la somme et du besoin que vous en avez. Tâchez de pourvoir aux besoins les plus pressants. Cela est plus aisé où vous êtes qu'ici, où toutes choses, et surtout le bois et le pain, sont d'une cherté horrible. Je ne veux pas, ma bonne maman. Entrez avec vous dans le détail des choses dont vous me parlez, parce que ce n'est pas le temps de vous rappeler quel a toujours été mon sentiment sur vos entreprises. Je vous dirai seulement qu'au milieu de toutes vos infortunes, votre raison et votre vertu sont des biens qu'on ne peut vous ôter et dont le principal usage se trouve dans les afflictions. Votre fils s'avance à grands pas vers sa dernière demeure. Le mal a fait un si grand progrès cet hiver que je ne dois plus m'attendre à en voir un autre. J'irai donc à ma destination, avec le seul regret de vous laisser malheureuse. On donnera le premier de mars la première représentation du Devin à l'Opéra de Paris. Je me ménage jusqu'à ce temps là avec un soin extrême, afin d'avoir le plaisir de le voir. Il sera rejoué aussi le lundi-gras au château de Bellevue en présence du roi, et madame la marquise de Pompadour y fera un rôle. Comme tout cela sera exécuté par des seigneurs et dames de la cour, je m'attends à être chanté faux et estropié, ainsi je n'irai point. D'ailleurs, n'ayant pas voulu être présenté au roi, je ne veux rien faire de ce qui aurait l'air d'en rechercher de nouveau l'occasion. Avec toute cette gloire, je continue à vivre de mon métier de copiste qui me rend indépendant et qui me rendrait heureux si mon bonheur pouvait se faire sans le vôtre et sans la santé. J'ai quelques nouveaux ouvrages à vous envoyer et je me servirai pour cela de la voix de M. Léonard ou de celle de M. l'abbé Gillot, faute d'en trouver de plus direct. Adieu, ma très bonne maman. Aimez toujours un fils qui voudrait vivre plus pour vous que pour lui-même. À Madame d'Épinay, ce dimanche matin, mai 1754. Voici mon maître et consolateur, Plutarque. Gardez-le sans scrupule aussi longtemps que vous le lirez, mais ne le gardez pas pour ne rien faire, et surtout ne le prêtez à personne, car je ne veux m'en passer que pour vous. Si vous pouvez faire donner à Mademoiselle Levasseur l'argent de sa robe, vous lui ferez plaisir, car elle a de petites emplettes à faire avant notre départ. Faites-moi dire si vous êtes délivré de votre colique et de vos tracas domestiques et comment vous avez passé la nuit. Bonjour, madame et amis. À Madame Goncheru, née Rousseau à Nyon. À Genève, le 11 juillet 1754 il y a quinze jours ma très bonne et très chère tante que je me propose chaque matin de partir pour aller vous voir vous embrasser et mettre à vos pieds un neveu qui se souvient avec la plus tendre reconnaissance des soins que vous avez pris de lui dans son enfance et de l'amitié que vous lui avez toujours témoignée des soins indispensables m'ont empêché jusqu'ici de suivre le penchant de mon cœur et me retiendront encore quelques jours. Mais rien ne m'empêchera de satisfaire mon empressement à cet égard le plus tôt qu'il me sera possible. Et j'aime encore mieux un retard qui me laissera le loisir de passer quelque temps près de vous que d'être obligé d'aller et revenir le même jour. Je ne puis vous dire quelle fête je me fais de vous revoir et de retrouver en vous cette chère et bonne tante que je pouvais appeler ma mère par les bontés qu'elle avait pour moi et à laquelle je ne pense jamais sans un véritable attendrissement. Je vous prie de témoigner à M. Goncheru le plaisir que j'aurai aussi de le revoir et d'être reçu de lui avec un peu de la même bonté que vous avez toujours eu pour moi. Je vous embrasse de tout mon cœur, l'un et l'autre, et suis avec le plus tendre et le plus respectueux attachement ma très chère et très bonne tante, votre très humble et très obéissant serviteur et neveu. À Madame Dupin, rue Plâtrière, à Paris. À Genève, le 20 juillet 1754. Me voici madame contre toute espérance heureusement arrivée dans ma patrie. Mon dessein n'était pas de partir sans recevoir vos ordres, et je me présentais en effet à votre porte la veille de mon départ, mais on me dit que vous étiez à la campagne chez monsieur de Vernage et que vous ne reviendriez que le surlendemain, de sorte que ne m'étant déterminé que peu de jours avant mon départ, le temps qui me restait ne me laissa pas à cet égard celui de faire mon devoir. Je ne puis vous dire, madame, combien Genève m'a paru embellie sans que rien n'y soit changé. Il faut que le changement soit dans ma manière de voir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette ville me paraît une des plus charmantes du monde, et ses habitants les hommes les plus sages et les plus heureux que je connaisse. La liberté y est bien affermie, le gouvernement tranquille, les citoyens éclairés, fermes et modestes, connaissant et soutenant courageusement leurs droits, mais respectant ceux d'autrui, et, par un traité que nous venons de conclure avec le roi de Sardaigne, notre souveraineté est enfin publiquement reconnue par le seul prince qui pourrait nous la disputer. J'ai pris hors de la ville un petit logement au bord du lac, et dans une situation délicieuse qui me rappelle celle de Chenonceau. On ne peut rien ajouter aux bontés avec lesquelles j'ai été reçu. Les caresses de mes concitoyens me laissent à peine quelques moments pour mon devoir et pour mes amis. Et il faut nécessairement, au train de vie que je mène ici, que ma santé se rétablisse ou se détruise tout à fait. On fait plus. On me sollicite de me fixer à Genève. Et je vous avoue que le plaisir d'être désiré et bien voulu dans ma patrie me déterminerait peut-être à y rester si des sentiments non moins forts et les promesses que j'ai faites à la bonne madame Levasseur ne me rappelaient à Paris, sans compter que la copie ferait la soupe fort maigre dans une aussi petite ville que celle ci. J'espère donc, madame, avoir l'honneur de vous revoir, sinon ce mois d'août, comme j'avais compté, du moins avant la fin de septembre. Mais ce qu'il y a de très sûr, c'est que, dans quelque lieu que je vive, je garderai précieusement au fond de mon cœur l'éternel et touchant souvenir de vos bontés et de vos bienfaits. Je suis, avec respect, madame, votre très humble et très obéissant serviteur. Je vous supplie de vouloir bien assurer monsieur Dupin de mes obéissances, de même que monsieur et madame de Chenonceau. Mademoiselle Levasseur prend la liberté de vous offrir ses très humbles respects. Elle travaille à mériter la continuation de vos bontés par ample recueil de contes qui puissent égayer vos insomnies. À Monsieur le comte de l'Astique, à Paris le 20 décembre 1755. Sans avoir l'honneur, monsieur, d'être connu de vous, j'espère qu'ayant à vous offrir des excuses et de l'argent, ma lettre ne saurait être mal reçue. J'apprends que mademoiselle de Cléry a envoyé de Blois un panier à une bonne vieille femme nommée madame Levasseur, et si pauvre qu'elle demeure chez moi. Que ce panier contenait, entre autres choses, un pot de vingt livres de beurre, que le tout est parvenu, je ne sais comment dans votre cuisine, que la bonne vieille, l'ayant appris, a eu la simplicité de vous envoyer sa fille, avec la lettre d'avis, vous redemander son beurre ou le prix qu'il a coûté, et qu'après vous être moqué d'elle, selon l'usage, vous et Madame votre épouse, vous avez pour toute réponse ordonné à vos gens de la chasser. J'ai tâché de consoler la bonne femme affligée en lui expliquant les règles du grand monde et de la grande éducation. Je lui ai prouvé que ce ne serait pas la peine d'avoir des gens s'ils ne servaient à chasser le pauvre quand il vient réclamer son bien. Et en lui montrant combien justice et humanité sont des mots roturiers, je lui ai fait comprendre à la fin qu'elle était trop honorée qu'un comte ait mangé son beurre. Elle me charge donc, monsieur, de vous témoigner sa reconnaissance de l'honneur que vous lui avez fait, son regret de l'importunité qu'elle vous a causée, et le désir qu'elle aurait que son beurre vous eût paru bon. Que si par hasard il vous en a coûté quelque chose pour le port du paquet à elle adressé, elle offre de vous le rembourser comme il est juste. Je n'attends là-dessus que vos ordres pour exécuter ses intentions, et vous supplie d'agréer les sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être à Madame Dupin, ce lundi matin 1755. Rousseau voudrait prier Madame Dupin de le prier à dîner, non qu'il croit avoir besoin d'invitation, mais pour s'assurer qu'il ne trouvera point d'autre belle dame que la maîtresse de la maison, défaut que sa présence ne laisse pas oublier, mais que son entretien répare. Raison ne soit point éperdue Près d'elle tu gagnes toujours Le sage te perd à sa vue Et te retrouve en ses discours. Ah. Miséricorde. Jean Jacques fait des vers. Pardon, madame. Et du secret, je vous supplie Ils sont échappés malgré moi. À monsieur Perdriot, ministre du Saint Évangile et pasteur à Genève. À Paris le 20 février 1755. Votre dernière lettre, monsieur, m'a fait un plaisir d'autant plus sensible que j'étais fort inquiet de l'impression qu'aurait faite sur vous ma précédente. Votre amitié m'en est devenue plus chère après l'avoir trouvée à l'épreuve de ma franchise. Toutes vos observations sont très sages, mais je m'assure que des intentions aussi pures que les miennes ne laisseront à personne le courage d'en avoir d'autres en me lisant. Vous avez su le mauvais succès de mes négociations pour la Bible de Sixtequin, mais vous n'avez pu savoir tout le chagrin qu'il m'a causé et quoiqu'il n'ait point eu de ma faute, je me reproche mon malheur dans cette circonstance comme je me reprocherais mon tort dans tout autre. Quant au manuscrit dont vous me parlez, il y a plus de six semaines que je l'ai remis à M Verne. Je souhaite qu'il ne se trouve pas indigne de la place qu'on veut bien lui accorder. Vous regretterez ainsi que moi l'illustre Montesquieu. C'est à ceux qui ont une patrie et qui l'aiment à pleurer ce grand homme. Il n'avait pas besoin d'une si longue vie pour être immortel, mais il eût dû vivre éternellement pour apprendre au peuple leurs droits et leurs devoirs. J'étais à la campagne quand il mourut, et j'appris que de tous les gens de lettres dont Paris fourmille, le seul M. Diderot avait accompagné son convoi. Heureusement, c'était aussi celui qui laissait le moins apercevoir l'absence des autres. J'ai eu ce carnaval un spectacle bien agréable, mais qui ne suffit pas pour consoler de celui-là. C'est le bonhomme Fontenelle, qui chez Madame Helvétius ouvrit le bal avec une jeune demoiselle de quatre ans. J'avais conseillé à la mère de ne pas manquer pour sa fille l'occasion de cette singularité. Je suis persuadé que ce sera pour la petite personne une anecdote mémorable qu'elle n'oubliera qu'à trente ans, comme de raison, mais qu'elle se rappellera dans sa vieillesse avec plaisir. Si le froid a été vif à Genève, il ne l'a guère moins été à Paris. Mais il se tempère depuis quelques jours et j'espère que nous en voilà tout à fait quitte. Je traduirai d'autant plus volontiers le quatrième volume de Giannone que j'aurai le plaisir, en y travaillant, de songer que vous vous êtes occupé de moi. Je vous embrasse avec respect et de tout mon cœur. Mille respects, je vous supplie, à Monsieur Kerry. À M. Jacob Verne, ministre du Saint-Évangile, à la Cité, à Genève. À Paris, le 2 avril 1755. Pour le coup, monsieur, voici bien du retard. Mais outre que je ne vous ai point caché mes défauts, vous devez songer qu'un ouvrier et un malade ne disposent pas toujours de leur temps comme ils aimeraient le mieux. D'ailleurs, l'amitié se plaît à pardonner, et l'on n'y met guère la sévérité qu'à la place du sentiment. Ainsi, je crois pouvoir compter sur votre indulgence. Vous voilà donc, messieurs, devenus auteurs périodiques. Je vous avoue que votre projet ne me rit pas autant qu'à vous. J'ai du regret de voir des hommes faits pour élever des monuments se contenter de porter des matériaux, et d'architectes se faire manœuvre. Qu'est-ce qu'un livre périodique Un ouvrage éphémère, sans mérite et sans utilité dont la lecture négligée et méprisée par les gens lettrés ne sert qu'à donner aux femmes et aux sots de la vanité sans instruction, et dont le sort, après avoir brillé le matin sur la toilette, est de mourir le soir dans la garde robe. D'ailleurs, pouvez vous vous résoudre à prendre des pièces dans les journaux et jusque dans le mercure, et à compiler des compilations s'il n'est pas impossible qu'il s'y trouve par hasard quelques bons morceaux, il est impossible que, pour le déterrer, vous n'ayez le dégoût d'en lire toujours une multitude de détestables. La philosophie du cœur coûtera cher à l'esprit s'il faut le remplir de tout ce fatras. Enfin, quand vous auriez assez de zèle pour soutenir l'ennui de toutes ces lectures, qui vous répondra que votre choix sera fait comme il doit l'être, que l'attrait de vos vues particulières ne l'emportera pas souvent sur l'utilité publique, ou que si vous ne songez qu'à cette utilité, l'agrément n'en souffrira point Vous n'ignorez pas qu'un bon choix littéraire est le fruit du goût le plus exquis. Et qu'avec tout l'esprit et toutes les connaissances imaginables, le goût ne peut assez se perfectionner dans une petite ville pour y acquérir cette sûreté nécessaire à la formation d'un recueil. Si le vôtre est excellent, qui le sentira S'il est médiocre et par conséquent détestable, aussi ridicule que le mercure suisse, il mourra de sa mort naturelle après avoir amusé depuis quelques mois les caillettes du pays de Vaud. Croyez-moi, monsieur, ce n'est point cette espèce d'ouvrage qui vous convient. Des ouvrages graves et profonds peuvent nous honorer. Tout le colifichet de cette petite philosophie à la mode nous va fort mal. Les grands objets, tels que la vertu et la liberté, étendent et fortifient l'esprit. Les petits, tels que la poésie et les beaux-arts, lui donnent plus de délicatesse et de subtilité. Il faut un télescope pour les uns, un microscope pour les autres, et les hommes accoutumés à mesurer le ciel ne sauraient disséquer des mouches. Voilà pourquoi Genève est le pays de la sagesse et de la raison, et Paris le siège du goût. Laissons en donc les raffinements assez myopes de la littérature qui passent leur vie à regarder des cirons au bout de leur nez. Sachons être plus fiers du goût qui nous manque que de celui qu'ils ont. Et tandis qu'ils feront des journaux et des brochures pour les ruelles, tâchons de faire des livres utiles et dignes de l'immortalité. « Après vous avoir tenu le langage de l'amitié, je n'en oublierai pas les procédés, et si vous persistez dans votre projet, je ferai de mon mieux un morceau tel que vous le souhaiterez, pour y remplir un vide tant bien que mal. »« Je me suis chargé depuis longtemps de vous faire pour M. Remy mille remerciements de vos bontés pour son fils, et je l'ai toujours oublié. »« Je vous prie de m'écrire désormais sous une enveloppe à l'adresse de M. de Fonvent, secrétaire de M. Dupin, fermier général à l'Hôtel des Fermes à Paris. » Bien des respects, je vous prie, à Messieurs Vernet et Jalabert, et recevez les miens avec mes embrassements. À Voltaire, à Paris le 10 septembre 1755. C'est à moi, monsieur, de vous remercier à tous égards. En vous offrant l'ébauche de mes tristes rêveries, je n'ai point cru vous faire un présent digne de vous, mais m'acquitter d'un devoir et vous rendre un hommage que nous vous devons tous comme à notre chef. Sensible d'ailleurs à l'honneur que vous faites à ma patrie, je partage la reconnaissance de mes concitoyens, et j'espère qu'elle ne fera qu'augmenter encore lorsqu'ils auront profité des instructions que vous pouvez leur donner. Embellissez l'asile que vous avez choisi, éclairez un peuple digne de vos leçons, et vous, qui savez si bien peindre les vertus et la liberté, apprenez-nous à les chérir dans nos murs comme dans vos écrits. Tout ce qui vous approche doit apprendre de vous le chemin de la gloire. Vous voyez que je n'aspire pas à nous rétablir dans notre bêtise, quoique je regrette beaucoup pour ma part le peu que j'en ai perdu. À votre égard, monsieur, ce retour serait un miracle si grand, à la fois et si nuisible, qu'il n'appartiendrait qu'à Dieu de le faire et qu'au diable de le vouloir. Ne tentez donc pas de retomber à quatre pattes. Personne au monde n'y réussirait moins que vous. Vous nous redressez trop bien sur nos deux pieds pour cesser de vous tenir sur les vôtres. Je conviens de toutes les disgrâces qui poursuivent les hommes célèbres dans les lettres. Je conviens même de tous les mots attachés à l'humanité, et qui semblent indépendants de nos vaines connaissances. Les hommes ont ouvert sur eux-mêmes tant de sources de misère que, quand le hasard en détourne quelqu'une, ils n'en sont guère moins inondés. D'ailleurs, il y a dans le progrès des choses, des liaisons cachées que le vulgaire n'aperçoit pas, mais qui n'échapperont point à l'œil du sage quand il y voudra réfléchir. Ce n'est ni Terence, ni Cicéron, ni Virgile, ni Sénèque, ni Tacite. Ce ne sont ni les savants ni les poètes qui ont produit les malheurs de Rome et les crimes des Romains. Mais, sans le poison lent et secret qui corrompit peu à peu le plus vigoureux gouvernement dont l'histoire est fait mention, Cicéron, ni Lucrèce, ni Saluste n'eussent point existé, ou n'eussent point écrit. Le siècle aimable de Lélius et de Terence amenait de loin le siècle brillant d'Auguste et d'Horace. Et enfin, les siècles horribles de Sénèque et de Néron, de Domitien et de Martial. Le goût des lettres et des arts naît chez un peuple d'un vice intérieur qui l'augmente. Et s'il est vrai que tous les progrès humains sont pernicieux à l'espèce, ceux de l'esprit et des connaissances qui augmentent notre orgueil et multiplient nos égarements accélèrent bientôt nos malheurs. Mais il vient un temps où le mal est tel que les causes mêmes qui l'ont fait naître sont nécessaires pour l'empêcher d'augmenter. C'est le fer qu'il faut laisser dans la plaie, de peur que le blessé n'expire en l'arrachant. Quant à moi, si j'avais suivi ma première vocation et que je n'eusse ni lu ni écrit, j'en aurais sans doute été plus heureux. Cependant, si les lettres étaient maintenant anéanties, je serais privé du seul plaisir qui me reste. C'est dans leur sein que je me console de tous mes maux. C'est parmi ceux qui les cultivent que je goûte les douceurs de l'amitié et que j'apprends à jouir de la vie sans craindre la mort. Je leur dois le peu que je suis, je leur dois même l'honneur d'être connu de vous. Mais consultons l'intérêt dans nos affaires et la vérité dans nos écrits. Quoiqu'il faille des philosophes, des historiens, des savants pour éclairer le monde et conduire ses aveugles habitants, si le sage même nom m'a dit vrai, je ne connais rien de si fou qu'un peuple de sages. Convenez-en, monsieur, s'il est bon que les grands génies instruisent les hommes, il faut que le vulgaire reçoive leurs instructions. Si chacun se mêle d'en donner, qui les voudra recevoir Les boiteux, dit Montaigne, sont mal propres aux exercices du corps, et aux exercices de l'esprit les âmes boiteuses. Mais en ce siècle savant, on ne voit que boiteux vouloir apprendre à marcher aux autres. Le peuple reçoit les écrits des sages pour les juger, non pour s'instruire. Jamais on ne vit tant de dandins. Le théâtre en fourmille, les cafés retentissent de leurs sentences, ils les affichent dans les journaux, les caisses sont couverts de leurs écrits, et j'entends critiquer l'orphelin, parce qu'on l'applaudit, à tel grimaud si peu capable d'en voir les défauts, qu'à peine en sent-il les beautés. Recherchons la première source des désordres de la société. Nous trouverons que tous les maux des hommes leur viennent de l'erreur bien plus que de l'ignorance, et que ce que nous ne savons point nous nuit beaucoup moins que ce que nous croyons savoir. Or, quel plus sûr moyen de courir d'erreur en erreur que la fureur de savoir tout Si l'on eût prétendu savoir que la Terre ne tournait pas, on n'eût point puni Galilée pour avoir dit qu'elle tournait. Si cent myrmidons aspiraient à la gloire, vous jouiriez en paix de la vôtre, ou du moins vous n'auriez que des rivaux dignes de vous. Ne soyez donc pas surpris de sentir quelques épines inséparables des fleurs qui couronnent les grands talents. Les injures de vos ennemis sont les acclamations satiriques qui suivent le cortège des triomphateurs. C'est l'empressement du public pour tous vos écrits qui produit les vols dont vous vous plaignez mais les falsifications n'y sont pas faciles, car le fer ni le plomb ne s'allient pas avec l'or. Permettez moi de vous le dire, par l'intérêt que je prends à votre repos et à notre instruction. Méprisez de vaines clameurs par lesquelles on cherche moins à vous faire du mal qu'à vous détourner de bien faire plus on vous critiquera, plus vous devrez vous faire admirer. Un bon livre est une terrible réponse à des injures imprimées. Et qui vous oserait attribuer des écrits que vous n'avez point faits tant que vous n'en ferez que d'inimitables Je suis sensible à votre invitation, et si cet hiver me laisse en état d'aller, au printemps, habiter ma patrie, j'y profiterai de vos bontés. Mais j'aimerais mieux boire de l'eau de votre fontaine que du lait de vos vaches. Et quant aux herbes de votre verger, je crains bien de n'y en trouver d'autre que le loto, qui n'est pas la pâture des bêtes, et le molly, qui empêche les hommes de le devenir. Je suis de tout mon cœur avec respect, etc. À Madame d'Épinay, vers mars 1756. J'ai lu avec grande attention, madame, vos lettres à monsieur votre fils. Elles sont bonnes, excellentes, mais elles ne valent rien pour lui, permettez moi de vous le dire avec la franchise que je vous dois. Malgré la douceur et l'onction dont vous croyez parer vos avis, le ton de ces lettres en général est trop sérieux. Il annonce votre projet, et, comme vous l'avez dit vous-même, si vous voulez qu'il réussisse, il ne faut pas que l'enfant puisse s'en douter. S'il avait vingt ans, elle ne serait peut-être pas trop forte, mais peut-être serait elle encore trop sèche. Je crois que l'idée de lui écrire est très heureusement trouvée et peut lui former le cœur et l'esprit, mais il faut deux conditions: c'est qu'il puisse vous entendre et qu'il puisse vous répondre. Il faut que ces lettres ne soient faites que pour lui, et les deux que vous m'avez envoyées seraient bonnes pour tout le monde excepté lui. Croyez-moi, gardez-les pour un âge plus avancé. Faites-lui des contes, faites-lui des fables dont il puisse lui-même tirer la morale et surtout qu'il puisse se les appliquer. Gardez-vous des généralités. On ne fait rien que de commun et d'inutile en mettant des maximes à la place des faits. C'est de tout ce qu'il aura remarqué, en bien ou en mal, qu'il faut partir. À mesure que ces idées commenceront à se développer et que vous lui aurez appris à réfléchir, à comparer, vous proportionnerez le ton de vos lettres à ses progrès et aux facultés de son esprit. Mais si vous dites à Monsieur votre fils que vous vous appliquez à former son cœur et son esprit que c'est en amusant que vous lui montrerez la vérité et ses devoirs, il va être en garde contre tout ce que vous lui direz. Il croira toujours voir sortir une leçon de votre bouche. Tout, jusqu'à sa toupie, lui deviendra suspect. Agissez ainsi, mais gardez-en bien le secret. À quoi sert-il par exemple de l'instruire des devoirs de votre état de mère Pourquoi lui faire retentir toujours à l'oreille les mots « soumission »,« devoir »,« vigilance »,« raison » Tout cela a un son effrayant à son âge. C'est avec les actions qui résultent de ces termes qu'il faut l'apprivoiser. Laissez-lui ignorer leurs qualifications jusqu'à ce que vous puissiez les lui apprendre par la conduite qu'il aura tenue. Et encore, faites-lui bien sentir avant tout l'avantage et l'agrément qu'il en aura recueilli afin de lui montrer qu'un acte de soumission et de devoir n'est pas une chose si effrayante qu'il pourrait se l'imaginer. Quant à la seconde lettre, si elle ne renferme pas des choses si contraires à votre but, elle est au moins remplie d'idées et d'images trop fortes, non seulement pour l'âge de monsieur votre fils, mais même pour un âge beaucoup au dessus du sien. Votre définition de la politesse est juste et délicate, mais il faut y penser deux fois pour en sentir toute la finesse. C'est il ce que c'est que l'estime, que la bienveillance? Est-il en état de distinguer l'expression volontaire ou involontaire d'un cœur sensible Comment lui ferez-vous entendre que le corps ne doit point courir après l'ombre et que l'ombre ne peut exister sans le corps qui l'a produit Prenez garde, madame, qu'en présentant de trop bonheur aux enfants des idées fortes et compliquées, ils sont obligés de recourir à la définition de chaque mot. Cette définition est presque toujours plus compliquée, plus vague que la pensée même. Ils en font une mauvaise application, et il ne leur reste que des idées fausses dans la tête. Et il en résulte un autre inconvénient, c'est qu'ils répètent en perroquet de grands mots auxquels ils n'attachent point de sens, et qu'à vingt ans, ils ne sont que de grands enfants ou de plats importants. Vous m'avez demandé mon avis par écrit, madame, le voilà. Je désire que vous vous en accommodiez, mais il ne m'est pas possible de vous en donner un autre. Si je ne me suis pas trompé sur votre compte, vous me pardonnerez ma brutalité, et vous recommencerez votre besogne avec plus de courage et de succès que jamais. À Madame d'Épinay, à Paris le 16 ou le 17 mars 1756. Il s'en faut beaucoup que mon affaire avec M. Tronchin ne soit faite, et votre amitié pour moi y met un obstacle qui me paraît plus que jamais difficile à surmonter. Mais vous avez plus consulté votre cœur que votre fortune et mon humeur dans l'arrangement que vous me proposez. Cette proposition m'a glacé l'âme. Que vous entendez mal vos intérêts de vouloir faire un valet d'un ami, et que vous me pénétrez mal si vous croyez que de pareilles raisons puissent me déterminer. Je ne suis point en peine de vivre ni de mourir, mais le doute qui m'agite cruellement, c'est celui du parti qui, durant ce qui me reste à vivre, peut m'assurer la plus parfaite indépendance. Après avoir tout fait pour elle, je n'ai pu la trouver à Paris. Je la cherche avec plus d'ardeur que jamais, et ce qui m'afflige cruellement depuis plus d'un an, est de ne pouvoir démêler où je la trouverai la plus assurée. Cependant, les plus grandes probabilités sont pour mon pays. Mais je vous avoue que je la trouverai plus douce auprès de vous. La violente perplexité où je me trouve ne peut durer encore longtemps. Mon parti sera pris dans sept ou huit jours. Mais, soyez bien sûr, que ce ne seront pas des raisons d'intérêt qui me détermineront. Parce que je n'ai jamais craint que le pain vint à me manquer, et qu'au pis-aller je sais comment on s'en passe. Je ne refuse pas au reste d'écouter ce que vous avez à me dire, pourvu que vous vous souveniez que je ne suis pas à vendre, et que mes sentiments, au-dessus maintenant de tout le prix qu'on y peut mettre, se trouveraient bientôt au-dessous de celui qu'on y aurait mis. Oublions donc l'un et l'autre qu'il ait même été question de cet article. Quant à ce qui vous regarde personnellement, je ne doute pas que votre cœur ne sente le prix de l'amitié, mais j'ai lieu de croire que la vôtre m'est bien plus nécessaire qu'à vous la mienne. Car vous avez des dédommagements qui me manquent et auxquels j'ai renoncé pour jamais. Je vous prie de bien vouloir dire à M. de Linan qu'il peut aller chez M. Diderot, rue taranne vis-à-vis la rue Saint-Benoît, prendre la souscription et les volumes qu'il a désiré d'avoir, et qu'il trouvera tout près. Pour trouver M. Diderot, il faut aller avant dix heures du matin. Bonjour, madame. Voilà encore un livre à vendre. Envoyez-moi mon opéra. À Madame d'Épinay, à Paris, mars 1756, ce mardi. Euh, enfin, Madame, j'ai pris mon parti, et vous vous doutez bien que vous l'emportez. J'irai donc passer les fêtes de Pâques à l'Ermitage, et j'y resterai tant que je m'y trouverai bien et que vous voudrez m'y souffrir. Mes projets ne vont pas plus loin que cela. Je vous irai voir demain, et nous en causerons. Mais toujours le secret, je vous en prie. Voilà maintenant un déménagement et des embarras qui me font trembler. Oh qu'on est malheureux d'être si riche. Il faudra que je laisse la moitié de moi-même à Paris, même quand vous n'y serez plus. Cette moitié sera des chaises, des tables, des armoires et tout ce qu'il ne faudra pas ajouter à ce que vous aurez mis à mon château. À demain. À madame d'Épinay, L'Ermitage, 12 avril 1756. Quoique le temps me contrarie depuis mon arrivée ici, je viens de passer les trois jours les plus tranquilles et les plus doux de ma vie. Ils le seront encore plus quand les ouvriers qu'occupent mon luxe ou votre sollicitude seront partis. Aussi je ne serai proprement dans ma solitude que d'ici à deux ou trois jours. En attendant, je m'arrange, non selon la morale turque qui veut qu'on ne s'établisse ici bas aucun domicile durable, mais selon la mienne qui me porte à ne jamais quitter celui que j'occupe. Vous me trouverez rangé délicieusement à la magnificence près que vous y avez mise, et qui toutes les fois que j'entre dans ma chambre me fait chercher respectueusement l'habitant d'un lieu si bien meublé. Au surplus, je ne vous conseille pas beaucoup de compter sur des compliments à notre première entrevue. Je vous réserve, au contraire, une censure grave d'être venu malade et souffrante m'installer ici sans égard pour vous ni pour moi. Hâtez-vous donc de me rassurer sur les suites de cette indiscrétion, et souvenez-vous une fois pour toutes que je ne vous pardonnerai jamais d'oublier ainsi mes intérêts en songeant aux vôtres. J'ai trouvé deux erreurs dans le compte joint à l'argent que vous m'avez remis. Toutes deux sont à votre préjudice et me font soupçonner que vous pourriez bien en avoir fait d'autres de même nature, ce qui ne vous réussirait pas longtemps. L'une est de quatorze livres, en ce que vous payez sept mains de papier de Hollande à cinq livres cinq sols, au lieu de trois livres cinq sols qu'il m'a coûté et que je vous ai marqué. L'autre est de six livres pour un Racine que je n'ai jamais eu et que par conséquent vous ne pouvez avoir vendu à mon profit. Ce sont donc vingt francs dont vous êtes crédité sur ma caisse. Soit dit sur l'argent et revenons à nous. Je n'ai songé qu'à moi ces jours-ci. Je savourais les beautés de mon habitation et les charmes d'une entière liberté. Mais en me promenant ce matin dans un lieu délicieux, j'y ai mis mon ancien ami Diderot à côté de moi. Et en lui faisant remarquer les agréments de la promenade, je me suis aperçu qu'il s'augmentait pour moi-même. Je ne sais si je pourrais jamais jouir réellement de cette augmentation. Si cela peut se faire un jour, ce ne sera guère que par le crédit de mon ancien ami Grimm. Peut-être pourra-t-il, et voudra-t-il bien, me procurer une visite de l'ami que je lui ai procuré, et partager avec moi le plaisir que j'aurai de le recevoir. Ce n'est pas encore le temps de parler de tout cela, mais vous, quand vous verra-t-on Vous enchantez Et votre sauveur sans affaire, il m'a promis de venir et le fera sans doute. Quant à vous, ma bonne amie, quelque envie que j'ai de vous voir, si vous venez sans lui, ne venez pas du moins sans sa permission. Bonjour. Malgré la barbe de l'ermite et la fourrure de l'ours, trouvez bon que je vous embrasse, et portez aux pieds du seigneur de la case les hommages de son très dévoué sujet et fontenier honoraire. Les gouverneuses veulent que je vous supplie d'agréer leur très humble respect. Elles s'accoutument ici presque aussi bien que moi et beaucoup mieux que mon chat. À Madame d'Épinay à Paris ce samedi 1er mai 1756. Je viens de courir les bois à la rosée et j'ai l'onglet. Ainsi je ne vous écris qu'un mot pour vous dire que je suis bien aise que vous vous portiez bien, que je me porte passablement aussi, que nous vous remercions tous et que j'espère vous voir ici avant que vous receviez ce billet. La petite fille de Madame Levasseur écrit à sa grand-mère comme si mon hôtesse n'avait pas encore été avertie que je quitte mon logement. Je vous prie, madame, en ce cas, de vouloir bien la faire avertir avant le 13. À Madame d'Épinay, à Épinay. De l'Ermitage avant le 17 septembre 1756. Je suis arrivé saucé et à une heure de la nuit, mais du reste sans accident, et je vous remercie de votre inquiétude. Votre jardinier a encore emporté ce matin des pêches au marché de Montmorency. On ne peut rien ajouter à l'effronterie qu'il met dans ses vols, et bien loin que ma présence ici le retienne, je vois très évidemment qu'elle lui sert de raison pour porter chez vous encore moins de fruits qu'à l'ordinaire. Il n'y aura de longtemps rien à faire à votre jardin. Vous, vous épargneriez les restes de votre fruit si vous lui donniez congé plus tôt que plus tard. Bien entendu que vous m'aurez fait avertir d'avance, et que vous vous ferez rendre en même temps la clé de la maison. À l'égard du lit et de ce qui est dans sa chambre, comme j'ignore ce qui est à vous ou à lui, je ne lui laisserai rien emporter sans un ordre de votre part. Il est inutile que personne couche ici, et si cela est nécessaire, je pourrais y faire coucher quelqu'un du voisinage sur qui je compte et à qui d'ailleurs je ne confierai pas la clé. En attendant, vous aurez le temps de faire chercher un jardinier. La seule précaution dont j'aurais besoin pour le repos des gouverneuses, ce serait un fusil ou des pistolets pour cet hiver. Mais je ne trouve personne qui m'en veuille prêter et il ne serait pas raisonnable d'en acheter. Au fond, je vois que nous sommes ici en parfaite sûreté et sous la protection des voisins. Je suis obligé de vous écrire tout ceci, car il est difficile d'avoir de conversations tranquilles dans les courts intervalles que j'ai à passer près de vous. Bonjour, madame. On va d'abord se mettre à votre ouvrage, et il se fera sans interruption. Mes respects à madame Desclavel et mes amitiés aux tyrans et à vos enfants. Mon pied va mieux, malgré la fatigue. Fin novembre ou début décembre 1756. À Madame d'Épinay, rue Saint-Honoré, vis-à-vis des Capucins, à Paris, ce mercredi, etc. Passe pour le cotillon, mais le sel. Jamais femme donna t elle à la fois de la chaleur et de la prudence. À la fin, vous me ferez mettre mon bonnet de travers, et je ne le redresserai plus. N'avez-vous pas assez fait pour vous? Faites maintenant quelque chose pour moi, et laissez-vous aimer à ma guise. Oh, que vous êtes bonne avec vos explications. Ah, ce cher rhumatisme. Maintenant que vous m'avez expliqué votre billet, expliquez-moi le commentaire, car cette glacière où je ne comprends rien y revient toujours, et pour moi je ne vous connais pas d'autre glacière qu'un recueil de musique française. Enfin vous avez vu l'homme, c'est toujours autant de prix, car je suis de votre avis, et je crois que c'est tout ce que vous en aurez. Je me doute pourtant bien de ce qu'un ours musqué devrait vous dire sur l'effet de ce premier entretien, mais... Quant à moi, je pense que le Diderot du matin voudra toujours vous aller voir, et que le Diderot du soir ne vous aura jamais vu. Vous savez que le rhumatisme le tient aussi quelquefois, et quand il ne plane pas sur ses deux grandes ailes auprès du soleil, on le trouve sur un tas d'herbes perclus des quatre pattes. Euh, Croyez-moi, si vous avez encore un cotillon de reste, vous ferez bien de le lui envoyer. Je ne savais pas que le pape Gaufrecourt fut malade, et l'on m'a même flatté de le voir aujourd'hui. Ce que vous m'avez marqué fera que s'il ne vient pas, j'en serai fort en peine. Encore de nouveaux plans Diable soit fait des plans, et plans, plans, relents en plans. C'est sans doute une fort belle chose qu'un plan, mais faites des détails et des scènes théâtrales. Il ne faut que cela pour le succès d'une pièce à la lecture, et même quelquefois à la représentation. Que Dieu vous préserve d'en faire une assez bonne pour cela. J'ai relu votre lettre pour y chercher les fautes d'orthographe, et n'y en ai pas su trouver une, quoique je ne doute pas qu'elle n'y soit. Je ne vous sais pas mauvais gré de les avoir faites, mais bien de les avoir remarquées. Moi j'en voulais faire exprès, pour vous faire honte, et n'y ai plus songé en vous écrivant. Bonjour, mon ami du temps présent et bien plus encore du temps à venir. Vous ne me dites rien de votre santé, ce qui me fait augurer qu'elle est bonne. À propos de santé, je ne sais pas s'il y a de l'orthographe dans ce chiffon, mais je trouve qu'il n'y a pas de grand sens, ce qui me fait croire que je n'aurais pas mal fait de me faire de votre cotillon une bonne calotte bien épaisse au lieu d'un gilet, car je sens que le rhumatisme ne me tient pas au cœur, mais à la cervelle. Je vous prie de vouloir bien demander au tyran ce que signifie un paquet qu'il m'a fait adresser, contenant deux écus de six francs. Cela me paraît un acompte un peu fort sur les parties d'échecs qu'il doit perdre avec moi. Diderot sort d'ici. Je lui ai montré votre lettre et la mienne. Je vous l'ai dit, il a conçu une grande estime pour vous, et ne vous verra point. Vous en avez assez fait, même pour lui. Croyez-moi, laissez-le aller. La maman levasseur est de retour et se porte un peu mieux. À Madame D'Épinay, rue Saint-Honoré, vis-à-vis les Capucins, à Paris, à l'Ermitage, le 13 mars 1757. Ma chère amie, il faudra que j'étouffe si je ne verse pas mes peines dans le sein de l'amitié. Diderot m'a écrit une lettre qui m'a percé l'âme. Il m'y fait entendre que c'est par grâce qu'il ne me regarde pas comme un scélérat, et qu'il y aurait bien à dire là-dessus, ce sont ses termes. Et cela savez-vous pourquoi Parce que Madame Levasseur est avec moi. Eh hey, bon Dieu, que dirait-il de plus si elle n'y était pas Je les ai recueillis dans la rue, elle et son mari, dans un âge où ils n'étaient plus en état de gagner leur vie. Elle ne m'a jamais rendu que trois mois de service. Depuis dix ans, je m'ôte pour elle le pain de la bouche. Je l'amène dans un bon air où rien ne lui manque. Je renonce pour elle au séjour de ma patrie. Elle est sa maîtresse absolue. Va et vient sans comprendre J'en ai autant de soins que de ma propre mère. Tout cela n'est rien. Et je ne suis qu'un scélérat si je ne lui sacrifie encore mon bonheur et ma vie. Et si je ne vais mourir de désespoir à Paris pour son amusement. Hélas, la pauvre femme ne le désire point, elle ne se plaint point, elle est très contente. Mais, je vois ce que c'est, monsieur Grimm ne sera pas content lui-même qu'il ne m'ait ôté tous les amis que je lui ai donnés. Philosophe des villes, si ce sont là vos vertus, vous me consolez bien de n'être qu'un méchant. J'étais heureux de ma retraite. La solitude ne m'est point à charge. Je crains peu la misère. L'oubli du monde m'est indifférent. Je porte mes maux avec patience. Mais aimer et ne trouver que des cœurs ingrats, ah, voilà le seul qui me soit insupportable. Pardon, ma chère amie, j'ai le cœur surchargé d'ennui et les yeux gonflés de larmes qui ne peuvent sortir. Si je pouvais vous voir un moment et pleurer, que je serais soulagé, mais je ne remettrais de ma vie les pieds à Paris. Pour le coup, je l'ai juré. J'oubliais de vous dire qu'il y a même de la plaisanterie dans la lettre du philosophe. Il devient un barbare avec légèreté. On voit qu'il se civilise. Marquez-moi, je vous prie, si vous avez fait quelque chose pour ce pauvre Romilly, si du moins vous lui avez parlé, ou s'il faut que je lui écrive, que je ne puis rien faire. À Madame d'Épinay, rue Saint-Honoré, vis-à-vis les Capucins, à Paris. Ce jeudi soir, 17 mars 1757. Madame Levasseur doit vous écrire, ma bonne amie. Je l'ai prié de vous dire sincèrement ce qu'elle pense. Pour la mettre bien à son aise, je lui ai déclaré que je ne voulais pas voir sa lettre, et je vous prie de ne me rien dire de ce qu'elle contient. Je n'enverrai pas la mienne à Diderot puisque vous vous y opposez. Mais, me sentant très grièvement offensé, il y aurait, à convenir d'un tort que je n'ai pas, une bassesse et une fausseté que je ne saurais me permettre et que vous me blâmeriez vous-même sur ce qui se passe au fond de mon cœur. L'Évangile ordonne bien à celui qui reçoit un soufflet d'offrir l'autre joue, mais non de demander pardon. Vous rappelez-vous cet homme de la comédie qui crie au meurtre en donnant des coups de bâton Voilà le rôle du philosophe. N'espérez pas l'empêcher de venir par le temps qu'il fait. Il serait très fâché qu'il fût plus beau. La colère lui donnera le loisir et les forces que l'amitié lui refuse, et ce sera la première fois de sa vie qu'il sera venu le jour qu'il avait promis. Il s'excédera pour venir à pied me répéter les injures qu'il me dit dans ses lettres. Je ne les endurerai rien moins que patiemment. Il se retournera être malade à Paris, et, moi, je paraîtrai à tout le monde un homme fort odieux. Patience. Il faut souffrir. N'admirez-vous pas la raison de cet homme qui me voulait venir prendre à Saint-Denis en fiacre, y dîner et me ramener en fiacre, et à qui, huit jours après, sa fortune ne permet plus d'aller à l'ermitage autrement qu'à pied Pour parler son langage, il n'est pas absolument impossible que ce soit là le ton de la bonne foi. Mais dans ce cas, il faut qu'il soit arrivé d'étranges révolutions dans sa fortune. Oh la philosophie je prends part au chagrin que vous donne la maladie de Madame votre mère, mais croyez que votre peine ne saurait approcher de la mienne. On souffre moins encore de voir malades les personnes qu'on aime qu'injustes et cruelles. Adieu, ma bonne amie. Voici la dernière fois que je vous parlerai de cette malheureuse affaire. Vous me parlez d'aller à Paris avec un sang-froid qui me réjouirait dans un autre temps. Je me tiens pour bien dites toutes les belles choses qu'il y aurait à dire là-dessus, mais avec tout cela, je n'irai de ma vie à Paris, et je bénis le ciel de m'avoir fait ours, ermite et têtu plutôt que philosophe. À Madame d'Épinay, ce samedi 26 mars 1757. Diderot m'a écrit une troisième lettre en me renvoyant mes papiers. Quoique vous me marquiez par la vôtre que vous m'envoyiez ce paquet, elle m'est parvenue plus tard et par une autre voie, de sorte que quand je l'ai reçue, ma réponse à Diderot était déjà faite. ⁇ Vous devez être aussi ennuyé de cette longue tracasserie que j'en suis excédé. Ainsi, n'en parlons plus, je vous supplie. ⁇ Mais où avez-vous pris que je me plaindrais de vous aussi Si j'avais à m'en plaindre, ce serait parce que vous usez de trop de ménagements avec moi et me traitez trop doucement. J'ai souvent besoin d'être plus gourmandé que cela. Un ton de gronderie me plaît fort quand je le mérite. Je crois que je serais homme à le regarder quelquefois comme une sorte de cajolerie de l'amitié. Mais on querelle son ami sans le mépriser. On lui dira fort bien qu'il est une bête. On ne lui dira pas qu'il est un coquin. Vous ne me ferez jamais entendre que vous me croyez faire grâce en pensant bien de moi. Vous ne m'insinuerez jamais qu'en y regardant de près, il y aurait beaucoup d'estime à rabattre. Vous ne me direz pas ⁇ Encore y aura-t-il bien à dire là-dessus ⁇ Ce ne serait pas seulement m'offenser, ce serait vous offenser vous-même, car il ne convient pas à d'honnêtes gens d'avoir des amis dont ils pensent mal que s'il m'était arrivé de mal interpréter sur ce point un discours de votre part, vous vous hâteriez assurément de m'expliquer votre idée, et vous garderiez de soutenir durement ce même propos dans le mauvais sens où je l'aurais entendu. Comment, madame, appelez vous cela une forme, un extérieur? J'ai envie, puisque nous traitons ce sujet, de vous faire ma déclaration sur ce que j'exige de l'amitié, et sur ce que j'y veux mettre à mon tour. Reprenez librement ce que vous trouverez à blâmer dans mes règles, mais attendez-vous à ne m'en pas voir départir aisément, car elles sont tirées de mon caractère que je ne puis changer. Premièrement, je veux que mes amis soient mes amis et non pas mes maîtres, qu'ils me conseillent sans prétendre me gouverner, qu'ils aient toutes sortes de droits sur mon cœur, aucun sur ma liberté. Je trouve très singulier les gens qui, sous ce nom, prétendent toujours se mêler de mes affaires sans rien me dire des leurs. Qu'ils me parlent toujours librement et franchement. Ils peuvent me tout dire. Or, le mépris, je leur permets tout. Le mépris d'un indifférent m'est indifférent. Mais si je le souffrais d'un ami, j'en serais digne. S'il a le malheur de me mépriser, qu'il ne me le dise pas, qu'il me quitte. C'est son devoir envers lui-même. À cela près, quand il me fait ses représentations, de quelque ton qu'il les fasse, il use de son droit. Mais quand, après l'avoir écouté, je fais ma volonté, j'use du mien, et je trouve mauvais qu'on me rabâche éternellement sur une chose faite. Leurs grands empressements, à me rendre mille services dont je ne me soucie point, me sont à charge. J'y trouve un certain air de supériorité qui me déplaît. D'ailleurs, tout le monde en peut faire autant. J'aime mieux qu'ils m'aiment et se laissent aimer. Voilà ce que les amis seuls peuvent faire. Je m'indigne surtout quand le premier venu les dédommage de moi, tandis que je ne peux souffrir qu'eux au monde. Il n'y a que leurs caresses qui puissent me faire supporter leurs bienfaits. Mais quand je fais tant que d'en recevoir d'eux, je veux qu'ils consultent mon goût et non pas le leur. Car nous pensons si différemment sur tant de choses que souvent ce qu'ils estiment bon me paraît mauvais. S'il survient une querelle, je dirais bien que c'est à celui qui a tort de revenir le premier. Mais ce n'est rien dire, car chacun croit toujours avoir raison. Tort ou raison, c'est à celui qui a commencé la querelle à la finir. Si je reçois mal sa censure, si je maigris son sujet, si je me mets en colère mal à propos, il ne doit pas s'y mettre à mon exemple, ou bien il ne m'aime pas. Au contraire, je veux qu'il me caresse bien, qu'il me baise bien, Entendez-vous, madame? En un mot, qu'il commence par m'apaiser, ce qui sûrement ne sera pas long, car il n'y eut jamais d'incendie au fond de mon cœur qu'une larme ne put éteindre. Alors, quand je serai attendri, calmé, honteux, confus, qu'il me gourmande bien, qu'il me dise bien mon fait, et sûrement il sera content de moi. S'il est question d'une minutie qui ne vaille pas l'éclaircissement, qu'on la laisse tomber, que l'agresseur se taise le premier et ne fasse pas un sot point d'honneur d'avoir toujours l'avantage. Voilà ce que je veux que mon ami fasse envers moi, et que je suis toujours prêt à faire envers lui dans le même cas. Je pourrais vous citer là-dessus une espèce de petit exemple dont vous ne vous doutez pas quoiqu'il vous regarde. C'est au sujet d'un billet que je reçus de vous il y a quelque temps en réponse à un autre dont je vis que vous n'étiez pas contente et où vous n'aviez pas, ce me sembla bien entendu, ma pensée. Je fis une réplique assez bonne, ou du moins elle me parut-elle. Elle avait sûrement le ton de la véritable amitié, mais en même temps une certaine vivacité dont je ne puis me défendre, et je craignis, en la relisant, que vous n'en fussiez pas plus contente que de la première. À l'instant, je jetai ma lettre au feu. Je ne puis vous dire avec quel contentement de cœur je vis brûler mon éloquence. Je ne vous en ai plus parlé et je crois avoir acquis l'honneur d'être battu. Il ne faut quelquefois qu'une étincelle pour allumer un incendie. Ma chère et bonne amie, Pythagore disait qu'on ne devait jamais attiser le feu avec une épée. Cette sentence me paraît la plus importante et la plus sacrée des lois de l'amitié. J'exige d'un ami bien plus encore que tout ce que je viens de vous dire, plus même qu'il ne doit exiger de moi et que je n'exigerais de lui s'il était à ma place et que je fusse à la sienne. En qualité de solitaire, je suis plus sensible qu'un autre. Si j'ai quelque tort avec un ami qui vive dans le monde, il y songe un moment et mille distractions le lui font oublier le reste de la journée. Mais rien ne me distrait sur les siens. Privé de sommeil, je m'en occupe durant la nuit entière. Seul à la promenade, je m'en occupe depuis que le soleil se lève jusqu'à ce qu'il se couche. Mon cœur n'a pas un instant de relâche, et les duretés d'un ami me donnent, dans un jour, des années de douleur. En qualité de malade, j'ai droit au ménagement que l'humanité doit à la faiblesse et à l'humeur d'un homme qui souffre. Quel est l'ami? Quel est l'honnête homme? qui ne doit pas craindre d'affliger un malheureux tourmenté d'une maladie incurable et douloureuse. Je suis pauvre, et il me semble que cet état mérite encore des égards. Tous ces ménagements que j'exige, vous les avez eus sans que je vous en parlasse, et sûrement jamais un véritable ami n'aura besoin que je les lui demande. Mais, ma chère amie, parlons sincèrement, me connaissez vous des amis? Ma foi bien m'en a pris d'apprendre à m'en passer, je connais force gens qui ne seraient pas fâchés que je leur en eusse obligation, et beaucoup à qui j'en ai en effet, mais des cœurs dignes de répondre aux miens. Ah. C'est bien assez d'en connaître un. Hein ne vous étonnez pas si je prends Paris toujours plus en haine. Il ne m'en vient rien que de chagrinant, hormis vos lettres. On ne m'y reverra jamais. Si vous voulez me faire vos représentations là-dessus, et même aussi vivement qu'il vous plaira, vous en avez le droit. Elles seront bien reçues et inutiles. Après cela, vous n'en ferez plus. Faites tout ce que vous jugerez à propos au sujet du livre de M. Dolbach, excepté de vous charger de l'édition. C'est une manière de faire acheter un livre par force et de mettre à contribution ses amis. Je ne veux point de cela. Je vous remercie du voyage d'Onson. Je vous le renverrai la semaine prochaine. Pardonnez les ratures. Je vous écris au coin de mon feu où nous sommes tous rassemblés. Les gouverneuses épousent avec le jardinier les histoires de tous les pendus du pays, et la gazette d'aujourd'hui est si abondante que je ne sais plus du tout ce que je dis. Bonjour, ma bonne amie. À M. Diderot, 26 mars 1757. J'ai envie de reprendre en peu de mots l'histoire de nos démêlés. Vous m'envoyâtes votre livre. Je vous écrivis là-dessus un billet le plus tendre et le plus honnête que j'ai écrit de ma vie, et dans lequel je me plaignais avec toute la douceur de l'amitié d'une maxime très louche et dont on pourrait me faire une application bien injurieuse. Je reçus, en réponse, une lettre très sèche, dans laquelle vous prétendez me faire grâce en ne me regardant pas comme un malhonnête homme, et cela uniquement parce que j'ai chez moi une femme de quatre-vingts ans. Comme si la campagne était mortelle à cet âge et qu'il n'y eut de femmes de quatre-vingts ans qu'à Paris. Ma réplique avait toute la vivacité d'un honnête homme insulté par son ami. Vous repartîtes par une lettre abominable. Je me défendis encore et très fortement, mais me défiant de la fureur où vous m'aviez mis et dans cet état même redoutant d'avoir tort avec un ami, j'envoyai ma lettre à Madame d'Épinay que je fis juge de notre différend. Elle me renvoya cette même lettre en me conjurant de la supprimer. Et je la supprimais. Vous m'en écrivez maintenant une autre dans laquelle vous m'appelez méchant, injuste, cruel, féroce. Voilà le précis de ce qui s'est passé dans cette occasion. Je voudrais vous faire deux ou trois questions très simples. Quel est l'agresseur dans cette affaire Si vous voulez vous en rapporter à un tiers, montrez mon premier billet, je montrerai le vôtre. En supposant que j'eusse mal reçu vos reproches et que j'eusse tort dans le fond, qui de nous deux était le plus obligé de prendre le ton de la raison pour y ramener l'autre? Je n'ai jamais résisté à un mot de douceur. Vous pouvez l'ignorer, mais vous pouvez savoir que je ne cède pas volontiers aux outrages. Si votre dessein dans toute cette affaire eût été de m'irriter, qu'eussiez vous fait de plus? Vous vous plaignez beaucoup des mots que je vous ai faits. Quels sont ils enfin, ces mots? serait ce de ne pas endurer assez patiemment ce que vous aimez à me faire, de ne pas me laisser tyranniser à votre gré, de murmurer quand vous affectez de me manquer de parole et de ne jamais venir lorsque vous l'avez promis? Si jamais je vous ai fait d'autres mots, articulez les moi, faire du mal à mon ami, tout cruel, tout méchant, tout féroce que je suis, je mourrais de douleur si je croyais jamais en avoir fait à mon plus cruel ennemi autant que vous m'en faites depuis six semaines. Vous me parlez de vos services. Je ne les avais point oubliés. Mais ne vous y trompez pas. Beaucoup de gens m'en ont rendu qui n'étaient pas de mes amis. Un honnête homme qui ne sent rien rend service et croit être ami. Il se trompe. Il n'est qu'un homme. Tout votre empressement, tout votre zèle pour me procurer des choses dont je n'ai que faire me touche peu. Je ne veux que de l'amitié. Et c'est la seule chose qu'on me refuse. Ingrat, je ne t'ai point rendu de service, mais je t'ai aimé. Et tu ne me paieras de ta vie ce que j'ai senti pour toi durant trois mois montre cet article à ta femme plus équitable que toi, et demande lui si, quand ma présence était douce à ton cœur affligé, je comptais mes pas et regardais autant qu'il faisait pour aller à Vincennes consoler mon ami. Homme insensible et dur, deux larmes versées dans mon sein m'eussent mieux valu que le trône du monde mais tu me les refuses, et tu te contentes de m'en arracher. Eh bien, garde tout le reste, je ne veux plus rien de toi il est vrai que j'ai engagé madame d'épinay à vous empêcher de venir samedi dernier nous étions tous deux irrités je ne sais point mesurer mes paroles et vous vous êtes défiant ombrageux pesant à la rigueur les mots lâchés inconsidérément et sujet à donner à mille choses simples un sens subtil auquel on n'a pas songé il était dangereux en cet état de nous voir de plus vous vouliez venir à pied vous risquiez de vous faire malade et n'en auriez pas peut-être été trop fâché je ne me sentais pas le courage de courir tous les dangers de cette entrevue. Cette frayeur ne méritait assurément pas vos reproches car quoi que vous puissiez faire, ce sera toujours un lien sacré pour mon cœur que celui de notre ancienne amitié. Et, dussiez vous m'insulter encore, je vous verrai toujours avec plaisir, quand la colère ne m'aveuglera pas. À l'égard de madame d'Epinay, je lui ai envoyé vos lettres et les miennes. Je serais étouffé de douleur sans cette communication. N'ayant plus de raison, j'avais besoin de conseils. Vous paraissez toujours si fier de vos procédés dans cette affaire que vous devez être fort content d'avoir un témoin qui les puisse admirer. Il est vrai qu'elle vous sert bien, et si je ne connaissais son motif, je la croirais aussi injuste que vous. Pour moi, plus j'y pense, moins je puis vous comprendre. Comment parce qu'à propos de je ne sais pas trop quoi, vous avez dit que le méchant est seul, faut-il absolument me rendre méchant et sacrifier votre ami à cette sentence Pour d'autres auteurs, l'alternative serait dangereuse, mais vous. D'ailleurs, cette alternative n'était point nécessaire. Votre sentence, quoique obscure et louche, est très vraie en un sens, et dans ce sens, elle ne me fait qu'honneur, car quoi que vous en disiez, je suis beaucoup moins seul ici que vous au milieu de Paris. Diderot. Diderot, je le vois avec une douleur amère. Sans cesse, au milieu des méchants, vous apprenez à leur ressembler. Votre bon cœur se corrompt parmi eux, et vous forcez le mien de se détacher insensiblement de vous. 29 mai 1757 À Madame d'Épinay, ce dimanche matin. Voilà, madame, les prémices de votre ermitage à ce que dit le jardinier. Faites-moi dire, je vous supplie des nouvelles de votre santé et de vos affaires, en attendant que les fêtes se passent, que les chemins s'essuient et me permettent de vous aller voir. Je fus mardi dîner à Aubonne, et pris en revenant de la pluie et d'un dérangement qui l'un et l'autre n'ont pas cessé jusqu'ici. Bonjour madame. Aimez-moi ermite comme vous m'aimiez ours, autrement je quitte mon froc et je reprends ma peau. Début de juillet 1757 À Sophie Doudeteau Je commence à ressentir l'effet des agitations terribles que vous m'avez si longtemps fait éprouver. Elles ont épuisé mon cœur, mes sens, tout mon être, et dans le supplice des privations les plus cruelles, j'éprouve l'accablement qui suit l'excès des plus doux plaisirs. Je sens à la fois le besoin de tous les biens, les douleurs de tous les maux, je suis malheureux, malade et triste, votre vue ne m'anime plus, le mal et le chagrin me consument. Eh bien, dans cet état d'anéantissement, mon cœur penche à vous encore et ne peut penser qu'à vous. Il faut que je vous écrive, mais ma lettre se sentira de mes langueurs. Vous souvient-il de m'avoir une fois reproché des cruautés bien raffinées ah. Si j'en juge par l'impression fatale que ces mots n'ont cessé de faire sur moi, c'est bien à vous qu'il faut reprocher ces cruautés. Je me garderai pour mon repos de rechercher avec trop de soin le sens qu'ils purent avoir dans la circonstance où vous les prononçâtes. Mais quelque signification qu'ils eussent, ils peuvent me rendre coupable, ils ne me rendront jamais séducteur. Que je vous dise une fois ce que vous devez attendre sur ce point difficile de votre tendre et trop faible ami, mes promesses n'ont jamais trompé personne, ce n'est pas par vous qu'elles commenceront. Vous avez assez vu de ma force à les tenir, vous m'avez assez vu me débattre dans leurs chaînes pour ne pas craindre que je puisse les briser. Ma passion funeste, vous la connaissez, il n'en fut jamais d'égal, je n'ai rien senti de pareil à la fleur de mes ans, elle peut me faire oublier tout et mon devoir même, excepté le vôtre cent fois elle m'eût déjà rendu méprisable si je pouvais l'être par elle sans que vous le devinssiez aussi. Non, je le sens. La vertu même près de vous ne m'est pas assez sacrée pour me faire respecter dans mes égarements le dépôt d'un ami. Mais vous êtes à lui. Si vous êtes à moi, je perds en vous possédant celle que j'honore, ou je vous ôte à celui que vous aimez. Non, Sophie. Je puis mourir de mes fureurs, mais je ne vous rendrai point vile. Si vous êtes faible et que je le vois, je succombe à l'instant même. Tant que vous demeurerez à mes yeux ce que vous êtes, je n'en trahirai pas moins mon ami dans mon cœur, mais je lui rendrai son dépôt aussi pur que je l'ai reçu. Le crime est déjà cent fois commis par ma volonté. S'il l'est dans la vôtre, je le consomme, et je suis le plus traître et le plus heureux des hommes. Mais, je ne puis corrompre celle que j'idolâtre. Qu'elle reste fidèle et que je meure. Ou qu'elle me laisse voir dans ses yeux qu'elle est coupable. Je n'aurai plus rien à ménager. Vers le 15 octobre 1757. À Sophie d'Oudeteau. -de Viens, Sophie. Que j'afflige ton cœur injuste, que je sois à mon tour sans pitié comme toi. Pourquoi t'épargnerais-je tandis que tu m'ôtes la raison, l'honneur et la vie Pourquoi te laisserais-je couler de paisibles jours à toi qui me rends les miens insupportables Ah, combien tu m'aurais été moins cruel si tu m'avais plongé dans le cœur un poignard au lieu du trait fatal qui me tue Vois ce que j'étais et ce que je suis devenu. Vois à quel point tu m'avais élevé et jusqu'où tu m'as avili. Quand tu daignais m'écouter, j'étais plus qu'un homme. Depuis que tu me rebutes, je suis le dernier des mortels. J'ai perdu le sens, l'esprit et le courage. D'un mot, tu m'as tout ôté. Comment peux-tu te résoudre à détruire ainsi ton propre ouvrage Comment oses-tu rendre indigne de ton estime celui qui fut honoré de tes bontés Ah, Sophie. Je t'en conjure, ne te fais point rougir de l'ami que tu as cherché. C'est pour ta propre gloire que je te demande compte de moi. Ne suis je pas ton bien? N'en as tu pas pris possession? Tu ne peux plus t'en dédire, et puisque je t'appartiens, malgré moi même et malgré toi, laisse moi du moins mériter de t'appartenir. Rappelle toi ces temps de félicité qui, pour mon tourment, ne sortiront jamais de ma mémoire. Cette flamme invisible dont je reçus une seconde vie plus précieuse que la première rendait à mon âme ainsi qu'à mes sens toute la vigueur de la jeunesse, l'ardeur de mes sentiments m'élevait jusqu'à toi. Combien de fois ton cœur, plein d'un autre amour, fut il ému des transports du mien? Combien de fois m'as tu dit dans le bosquet de la cascade? Vous êtes l'amant le plus tendre dont j'eusse l'idée non jamais homme n'aima comme vous. Quel triomphe pour moi que cet aveu dans ta bouche. Assurément il n'était pas suspect, il était digne des feux dont je brûlais de t'y rendre sensible en dépit des tiens, et de t'arracher une pitié que tu te reprochais si vivement. Et pourquoi te la reprocher En quoi donc étais tu coupable En quoi la fidélité était elle offensée par des bontés qui laissaient ton cœur et tes sens tranquilles si j'eusse été plus aimable et plus jeune, l'épreuve eût été plus dangereuse. Mais puisque tu l'as soutenue, pourquoi t'en repentir Pourquoi changer de conduite avec tant de raisons d'être contente de toi Ah, que ton amant même serait fier de ta constance s'il savait ce qu'elle a surmonté. Si ton cœur et moi sommes seuls témoins de ta force, c'est à moi seul à m'en humilier. Étais-je digne de t'inspirer des désirs mais quelquefois il s'éveille malgré qu'on en ait et tu suis toujours triomphé des tiens. Où est le crime d'écouter un autre amour si ce n'est le danger de le partager? Loin d'éteindre tes premiers feux, les miens semblaient les irriter encore. Ah, si jamais tu fus tendre et fidèle, n'est-ce pas dans ces moments délicieux où mes pleurs t'en arrachaient quelquefois, où les épanchements de nos cœurs s'excitaient mutuellement, où, sans se répondre, ils savaient s'entendre, où ton amour s'animait aux expressions du mien, et où l'amant qui t'est cher recueillait au fond de ton âme tous les transports exprimés par celui qui t'adore. L'amour a tout perdu par ce changement bizarre que tu couvres de si vains prétextes. Il a perdu ce divin enthousiasme qui t'élevait à mes yeux au-dessus de toi-même, qui te montrait à la fois charmante par tes ferveurs, sublime par ta résistance, et redoublait par tes bontés mon respect et mes adorations. Il a perdu chez toi cette confiance aimable qui te faisait verser dans ce cœur qui t'aime tous les sentiments du tien. Nos conversations étaient touchantes un attendrissement continuel les remplissait de son charme. Mes transports que tu ne pouvais partager ne laissaient pas de te plaire, et j'aimais à t'entendre exprimer les tiens pour un autre objet qui leur était cher, tant l'épanchement et la sensibilité ont de prix, même sans celui du retour. Non. Quand j'aurais été aimé, à peine aurais-je pu vivre dans un état plus doux, et je te défie de jamais dire à ton amant même rien de plus touchant que ce que tu me disais de lui mille fois le jour. Qu'est devenu ce temps, cet heureux temps, la sécheresse et la gêne, la tristesse ou le silence remplissent désormais nos entretiens Deux ennemis deux indifférents vivraient entre eux avec moins de réserve que ne font nos deux cœurs faits pour s'aimer. Le mien, resserré par la crainte, n'ose plus donner l'essor au feu dont il est dévoré. Mon âme intimidée se concentre et s'affaisse sur elle-même. Tous mes sentiments sont comprimés par la douleur. Cette lettre, que j'arrose de froides larmes, n'a plus rien de ce feu sacré qui coulait de ma plume en de plus doux instants. Si nous sommes un moment sans témoins, à peine ma bouche ose-t-elle t'exprimer un sentiment qui m'oppresse qu'un air triste et mécontent le resserre au fond de mon cœur. Le vôtre, à son tour, n'a plus rien à me dire. Hélas, n'est-ce pas me dire assez combien vous vous déplaisez avec moi que de ne me plus parler de ce que vous aimez Ah Parlez-moi de lui sans cesse, afin que ma présence ne soit pas pour vous sans plaisir. Il vous est plus aisé de changer, ô oh Sophie, que de cacher ce changement à mes yeux. N'alléguez plus de fausses excuses qui ne peuvent m'en imposer. Les événements ont pu vous forcer à une circonspection dont je ne me suis jamais plaint, mais tant que le cœur ne change pas, les circonstances ont beau changer, son langage est toujours le même. Et si la prudence vous force à me voir plus rarement, qui vous force de perdre avec moi le langage du sentiment pour prendre celui de l'indifférence ah, Sophie, Sophie, ose oh, me dire que ton amant t'est plus cher aujourd'hui que quand tu daignais m'écouter et me plaindre, et que tu m'attendrissais à mon tour aux expressions de ta passion pour lui. Tu l'adorais et te laissais adorer, tu soupirais pour un autre, mais ma bouche et mon cœur recueillaient tes soupirs. Tu ne te faisais point un vain scrupule de lui cacher les entretiens qui tournaient au profit de ton amour. Le charme de cet amour croissait sous celui de l'amitié. Ta fidélité s'honorait du sacrifice des plaisirs non partagés. Tes refus, tes scrupules étaient moins pour lui que pour moi. Quand les transports de la plus violente passion qui fut jamais t'excitaient à la pitié, tes yeux inquiets cherchaient dans les miens si cette pitié ne t'ôterait point mon estime, et la seule condition que tu mettais aux preuves de ton amitié était que je ne cesserais point d'être ton ami. Cesser d'être ton ami Chère et charmante Sophie, vivre et ne plus t'aimer est-il pour mon âme un état possible et comment mon cœur se fut-il détaché de toi, quand aux chaînes de l'amour tu joignais les doux nœuds de la reconnaissance J'en appelle à ta sincérité, toi qui vis, qui causa ce délire, ces pleurs, ces ravissements, ces extases, ces transports qui n'étaient pas faits pour un mortel. Dis, ai-je goûté tes faveurs de manière à mériter de les perdre Ah non. Tu t'es barbarement prévalu pour me les ôter des tendres craintes qu'elles m'ont inspirées. J'en suis devenu plus épris mille fois, il est vrai, mais plus respectueux, plus soumis, plus attentif à ne jamais t'offenser. Comment ton bon cœur a-t-il pu se résoudre, en me voyant tremblant devant toi, à s'armer de ma passion contre moi-même et à me rendre misérable pour avoir mérité d'être heureux? Le premier prix de tes bontés fut de m'apprendre à vaincre mon amour par lui même, de sacrifier mes plus ardents désirs à celles qui les faisaient naître et mon bonheur à ton repos. Je ne rappellerai point ce qui s'est passé ni dans ton parc ni dans ta chambre mais pour sentir jusqu'où l'impression de tes charmes inspire à mes sens l'ardeur de te posséder, ressouviens-toi du mont Olympe, ressouviens-toi de ces mots écrits au crayon sur un chêne. J'aurais pu les tracer du plus pur de mon sang, et je ne saurais te voir ni penser à toi qu'ils ne s'épuisent et ne renaissent sans cesse. Depuis ces moments délicieux où tu m'as fait éprouver tout ce qu'un amour plein et non partagé peut donner de plaisir au monde, tu m'es devenu si cher que je n'ai plus osé désirer d'être heureux à tes dépens, et qu'un seul refus de ta part eût fait taire un délire insensé je m'en serais livré plus innocemment aux douceurs de l'état où tu m'avais mis. L'épreuve de ta force m'eût rendu plus circonspect à t'exposer à des combats que j'avais trop peu su te rendre pénible. J'avais tant de titres pour mériter que tes faveurs et ta pitié même ne me fussent point ôtées. Hélas. Que faut il que je me dise pour me consoler de les avoir perdus, si ce n'est que j'aimais trop pour les savoir conserver? J'ai tout fait pour remplir les dures conditions que tu m'avais imposées. Je leur ai conformé toutes mes actions, et si je n'ai pu contenir de même mes discours, mes regards, mes ardents désirs, de quoi peux-tu m'accuser, si ce n'est de m'être engagé pour te plaire à plus que la force humaine ne peut tenir? Sophie, j'aimais trente ans la vertu. Accrois-tu que j'ai déjà le cœur endurci au crime? Non. Mes remords égalent mes transports, c'est tout dire. Mais pourquoi ce cœur se livrait il aux légères faveurs que tu daignais m'accorder, tandis que son murmure effrayant me détournait si fortement d'un attentat plus téméraire? Tu le sais, toi qui vis mes égarements, si même alors ta personne me fut sacrée, jamais mes ardents désirs, jamais mes tendres supplications n'osèrent un instant solliciter le bonheur suprême que je ne me sentisse arrêté par les cris intérieurs d'une âme épouvantée. Cette voix terrible qui ne trompe point me faisait frémir à la seule idée de souiller de parjure et d'infidélité, celle que j'aime, celle que je voudrais voir aussi parfaite que l'image que j'emporte au fond de mon cœur, celle qui doit m'être inviolable à tant de titres. J'aurais donné l'univers pour un moment de félicité, mais ta vie lire, Sophie Ah non, il n'est pas possible, et quand j'en serai le maître, je t'aime trop pour te posséder jamais. » Rends donc à celui qui n'est pas moins jaloux que toi de ta propre gloire des bontés qui ne sauraient la blesser. Je ne prétends m'excuser ni envers toi, ni envers moi même je me reproche tout ce que tu me fais désirer. S'il n'eût fallu triompher que de moi, peut-être l'honneur de vaincre m'en eût il donné le pouvoir. Mais de voir, au dégoût de ce qu'on aime, des privations qu'on eût dû s'imposer, ah, c'est ce qu'un cœur sensible ne peut supporter sans désespoir. Tout le prix de la victoire est perdu dès qu'elle n'est pas volontaire. Si ton cœur ne m'ôtait rien, qu'il serait digne du mien de tout refuser. Si jamais je puis me guérir, ce sera quand je n'aurai que ma passion seule à combattre. Je suis coupable. Je le sens trop. Mais je m'en console en songeant que tu ne l'es pas. Une complaisance insipide à ton cœur, Qu'est-elle pour toi qu'un acte de pitié, dangereux à la première épreuve, indifférent pour qui l'a pu supporter une fois? Oh, Sophie, après des moments si doux, l'idée d'une éternelle privation est trop affreuse à celui qui gémit de ne pouvoir s'identifier avec toi. Quoi? Tes yeux attendris ne se baisseraient plus avec cette douce pudeur qui m'enivre de volupté? Quoi? Mes lèvres brûlantes ne déposeraient plus sur ton cœur mon âme avec mes baisers. Quoi Je n'éprouverais plus ce frémissement céleste, ce feu rapide et dévorant qui plus prompt que l'éclair. Oh, moment, moment inexprimable. Quel cœur, quel homme, quel dieu peut avoir ressenti et renoncer à toi Souvenirs amers et délicieux, laisserez-vous jamais mes sens et mon cœur en paix, et toutefois les plaisirs que vous me rappelez ne sont point ceux qu'ils regrettent le plus. Ah, non, Sophie, il en fut pour moi de plus doux encore, et dont ceux-là attirent leur plus grand prix parce qu'ils en étaient le gage. Il fut, il fut un temps où mon amitié t'était chère et où tu savais me le témoigner. Ne m'eusses-tu rien dit? Ne m'eusses tu fait aucune caresse un sentiment plus touchant et plus sûr m'évertissait que j'étais bien avec toi. Mon cœur te cherchait, et le tien ne me repoussait pas. L'expression du plus tendre amour qui fut jamais n'avait rien de rebutant pour toi. On eût dit, à ton empressement à me voir, que je te manquais quand tu ne m'avais pas vu. Tes yeux ne fuyaient pas les miens, et leurs regards n'étaient pas ceux de la froideur. Tu cherchais mon bras à la promenade, tu n'étais pas si soigneuse à me dérober l'aspect de tes charmes, et quand ma bouche osait presser la tienne, quelquefois au moins je la sentais résister. Tu ne m'aimais pas, Sophie, mais tu te laissais aimer, et j'étais heureux. Tout est fini, je ne suis plus rien, et me sentant étranger à charge importun près de toi, je ne suis pas moins misérable de mon bonheur passé que de mes peines présentes. Ah, si je ne t'avais jamais vu attendrie, je me consolerais de ton indifférence et me contenterais de t'adorer en secret, mais me voir déchirer le cœur par la main qui me rendit heureux et être oublié de celle qui m'appelait son doux ami. Ô oh, toi, qui peux tout sur mon être, apprends-moi à supporter cet état affreux, ou le change, ou me fait mourir. Je voyais les douleurs que m'apprêtait la fortune, et je m'en consolais en y voyant tes plaisirs. J'ai appris à braver les outrages du sort, mais les tiens, qui me les fera supporter la vallée que tu fuis pour me fuir, le prochain retour de ton amant, les intrigues de ton indigne sœur, l'hiver qui nous sépare, mes maux qui s'accroissent, ma jeunesse qui fuit de plus en plus, tandis que la tienne est dans sa fleur, tout se réunit pour monter tout espoir. Mais rien n'est au-dessus de mon courage que tes mépris. Avec la consolation du cœur, je dédaignerais les plaisirs des sens, je m'en passerais au moins. Si tu me plaignais, je ne serais plus à plaindre. Aide-moi de grâce à m'abuser moi-même. Mon cœur affligé ne demande pas mieux. Je cherche moi-même sans cesse à te supposer pour moi le tendre intérêt que tu n'as plus. Je force tout ce que tu me dis pour l'interpréter en ma faveur. Je m'applaudis de mes propres douleurs quand elles semblent t'avoir touché. Dans l'impossibilité de tirer de toi de vrais signes d'attachement, un rien suffit pour m'en créer de chimérique à notre dernière entrevue, où tu déployais de nouveaux charmes pour m'enflammer, de nouveaux feux, deux fois tu me regardas en dansant, tous tes mouvements s'imprimaient au fond de mon âme, mes avides regards traçaient tous tes pas, pas un de tes gestes n'échappait à mon cœur, et dans l'éclat de ton triomphe, ce faible cœur avait la simplicité de croire que tu daignais t'occuper de moi. Cruel, rends moi l'amitié qui m'est si chère, tu me l'as offerte, je l'ai reçue, tu n'as plus droit de me l'ôter. Ah, si jamais je te voyais un vrai signe de pitié, que ma douleur ne te fût point importune, qu'un regard attendri se tourna sur moi, que ton bras se jeta autour de mon cou, qu'il me pressa contre ton sein, que ta voix douce me dit avec un soupir, infortuné, que je te plains. Oui, tu m'aurais consolé de tout, mon âme reprendrait sa vigueur, et je redeviendrais digne encore d'avoir été bien voulu de toi. À M. de Saint-Lambert, à l'Ermitage, le 29 octobre 1757. Que de joie et de tristesse me viennent de vous, mon cher ami. À peine l'amitié est-elle commencée entre nous que vous m'en faites sentir en même temps tous les tourments et tous les plaisirs. Je ne vous parlerai point de l'impression que m'a faite la nouvelle de votre accident. Madame D'épinay en a été témoin. Je ne vous peindrai point non plus les agitations de notre ami. Votre cœur est fait pour les imaginer. Et moi, la voyant hors d'elle-même, j'avais à la fois le sentiment de votre état et le spectacle du sien. Jugez celui de votre ami. On voit bien à vos lettres que vous êtes de nous tous le moins sensible à vos mots. Mais pour exciter le zèle et les soins que vous devez à votre guérison, songez, je vous en conjure, que vous avez en dépôt l'espoir de tout ce qui vous est cher. Au reste, quel que soit l'effet des eaux dont j'attends tout, le bonheur ne réside point dans le sentiment d'une jambe ou d'un bras. Tant que votre cœur sera sensible, soyez sûr, mon cher et digne ami, qu'il pourra faire des heureux et l'être. Notre ami vint mardi faire ses adieux à la vallée. J'y passais une demi-journée triste et délicieuse. Nos cœurs vous plaçaient entre eux, et nos yeux n'étaient point secs en parlant de vous. Je lui dis que son attachement pour vous était désormais une vertu. Elle en fut si touchée qu'elle voulut que je vous l'écrivisse, et je lui obéis volontiers. Oui, mes enfants, soyez-je à jamais unis. Il n'est plus d'âme comme les vôtres, et vous méritez de vous aimer jusqu'au tombeau. Il m'est doux d'être entière dans une amitié si tendre. Je vous remercie du cœur que vous m'avez rendu et dont le mien n'est pas indigne. L'estime que vous lui devez et celle dont elle m'honore vous feront sentir toute votre vie l'injustice de vos soupçons. Vous savez mon raccommodement avec Grimm. J'ai cette obligation de plus à Madame d'Épinay et l'honneur d'avoir fait toutes les avances. J'en fis autant avec Diderot et j'eus cette obligation à notre ami. Qu'on ait tort ou qu'on ait raison, je trouve qu'il est toujours doux de revenir à son ami, et le plaisir d'aimer me semble plus cher à un cœur sensible que les petites vanités de l'amour propre. Vous savez aussi le prochain départ de Madame D'épinay pour Genève. Elle m'a proposé de l'accompagner sans me montrer là-dessus beaucoup d'empressement. Moi. La voyant escortée de son mari, du gouverneur de son fils, de cinq ou six domestiques, aller chez son médecin et son ami, et par conséquent mon cortège lui étant fort inutile, sentant d'ailleurs qu'il me serait impossible de supporter avec mon mal et dans la saison où nous entrons une chaise de poste jusqu'à Genève, et joignant aux obstacles tirés de ma situation présente la gêne insurmontable que j'éprouve toujours à vivre chez autrui, je n'ai pas accepté le voyage, et elle s'est contentée de mes raisons. Là-dessus, Diderot m'écrit un billet extravagant, dans lequel, me disant, surchargé du poids des obligations que j'ai à Madame d'Épinay, il me représente ce voyage comme indispensable, en quelque état que soit ma santé, jusqu'à vouloir que je suive plutôt à pied la chaise de poste. Mais ce qui m'a surtout percé le cœur, c'est de voir que votre ami est du même avis et m'ose donner les conseils de la servitude. On dirait qu'il y a une ligue entre tous mes amis pour abuser de mon état précaire et me livrer à la merci de Madame d'Épinay. Laissant ici les gens qu'il faut entretenir, partant sans argent, sans habits, sans linge, je serai forcé de tout recevoir d'elle et peut-être de lui tout demander. L'amitié peut confondre les biens ainsi que les cœurs. Mais dès qu'il sera question de devoirs et d'obligations, étant encore à ses gages, je ne serai plus chez elle comme son ami, mais comme son valet. Et quoi qu'il arrive, je ne veux pas l'être, ni m'aller étaler dans mon pays à la suite d'une fermière générale. Cependant j'ai écrit à Grimm une longue lettre dans laquelle je lui dis mes raisons, et le laisse mettre de décider si je dois partir ou non, résolu de suivre à l'instant son avis. Mais j'espère qu'il ne m'avilira pas. Jusqu'ici, je n'ai point de réponse positive, et j'apprends que Madame D'épinay part demain. Je me sens en écrivant cet article dans une agitation qui me le ferait indiscrètement prolonger. Il faut finir, mon ami. Que n'êtes-vous ici Je verserai mes peines dans votre âme, elle entendrait la mienne et ne donnerait point à ma juste fierté le vil nom d'ingratitude. Quoi qu'il en soit, on ne m'enchaînera jamais par certains bienfaits. Je m'en suis toujours défendu, je méprise l'argent, je ne sais point mettre à prix ma liberté, et si le sort me réduit à choisir entre les deux vices que j'aborde le plus, mon parti est pris, et j'aime encore mieux être un ingrat qu'un lâche. Je ne dois point finir cette lettre sans vous donner un avis qui nous importe à tous. La santé de notre ami se délabre sensiblement. Elle est maigrie. Son estomac va mal. Elle ne digère point. Elle n'a plus d'appétit. Et ce qu'il y a de pire est que le peu qu'elle mange ne sont que des choses malsaines. Elle était déjà changée avant votre accident. Jugez de ce qu'elle est et de ce qu'elle va devenir. Elle confie à des la direction de sa santé. On lui a conseillé les eaux de Passy. Mais ce qui importe beaucoup plus à lui conseiller est le choix d'un médecin qui sache l'examiner et la conduire et d'un régime qui n'augmente pas le désordre de son estomac. J'ai dit là-dessus tout ce que j'ai pu mais inutilement c'est à vous d'obtenir ce qu'elle refuse à mon amitié c'est surtout par le soin que vous prendrez de vous que vous l'engagerez à en prendre d'elle adieu mon ami à madame la comtesse d'oudetot à l'ermitage le 1er novembre 1757 je viens de recevoir de Grimm une lettre qui m'a fait frémir et que je me suis hâté de lui renvoyer de peur de la lire une seconde fois. Madame, tous ceux que j'aimais me haïssent et vous connaissez mon cœur. C'est vous en dire assez. Tout ce que j'avais appris de Madame d'Épinay n'est que trop vrai et j'en sais davantage encore. Je ne trouve de toute part que des sujets de désespoir. Il me reste une seule espérance. Elle peut me consoler de tout et me rendre le courage. C'est à vous de la confirmer ou de la détruire. Ai-je encore une amie et un ami Un mot, un seul mot et je puis vivre. Je vais déloger de l'ermitage. Mon dessein est de chercher un asile éloigné et inconnu. Mais il faut passer l'hiver. Et les ordres que vous m'avez prescrits m'empêchent de l'aller passer à Paris quand j'en serai tenté. Je vais donc m'établir à Montmorency comme je pourrais en attendant le retour du printemps. Ma respectable amie, je ne vous reverrai jamais. Je le sens à la tristesse qui me serre le cœur, mais je m'occuperai de vous dans ma retraite, je songerai que j'ai deux amis au monde et j'oublierai que j'y suis seul. Un mot de réponse je vous conjure. À Madame Doudotot, ce 2 novembre, jour de deuil et d'affliction 1757. Voici la quatrième lettre que je vous écris sans réponse. Ah, si vous continuez de vous taire, je vous aurais trop entendu. Songez à l'état où je suis et consultez votre cœur. Je puis être abandonné de tout le monde et le supporter, mais vous, vous, me haïr, vous, me mépriser, vous qui connaissez mon cœur. Grand Dieu, suis-je un scélérat Un scélérat moi, je l'apprends bien tard. C'est Monsieur Grimm, c'est mon ancien ami, c'est celui qui me doit tous les amis, qu'il m'ôte, qui a fait cette belle découverte et qui la publie. Hélas, il est l'honnête homme et moi l'ingrat. Il jouit des honneurs de la vertu pour avoir perdu son ami et moi je suis dans l'opprobre. Et pourquoi? Pour n'avoir pu flatter une femme perfide, ni m'asservir à celle que j'étais forcé de haïr. Mais il faut se taire et se laisser mépriser providence providence et l'âme ne serait pas immortelle je suis un méchant moi quoi cette indignation de l'honneur outragé ces élancements de douleur ces sanglots qui me suffoquent seraient la saint-dérèse du crime ah, si je suis un méchant, que tout le genre humain est vil, qu'on me montre un homme meilleur que moi, que me montre une âme plus aimante, plus sensible, plus éprise des charmes de l'amitié, plus touchée de l'honnête et du beau, qu'on me la montre, et je me tais. Vous qui m'avez connu, dites-moi, tu es méchant, et je me punis. L'agitation me presse. Je ne puis respirer. Ah. Mon ami. Ah. Saint Lambert. Fallait il céder aux séductions de la fausseté et faire mourir de douleur celui qui ne vivait que pour vous aimer? Cruel. Je ne supporterai pas longtemps mon opprobre. J'espère que la nature ne tardera pas à vous délivrer de moi et à me venger de vous en vous laissant quelques regrets de mon sort et de votre injustice. Adieu. Je ne vous parlerai plus de moi. Mais si je ne puis vous oublier, je vous défie d'oublier à votre tour ce cœur ami de la vertu, ce cœur que vous méprisez, ni d'en trouver jamais un semblable. Je veux écrire à Saint-Lambert j'en ai besoin pour la paix de mon âme surchargée d'ennui. Je vous prie de me faire dire si vous permettez que je vous adresse la lettre et de m'apprendre s'il est à Aix la-chapelle, et si c'est là qu'il faut lui écrire. Un mot que vous chargeriez votre laquais de m'écrire suffit pour cela. Il me serait bien doux d'apprendre en même temps comment il se porte. À Madame d'Oudeteau, le 3 novembre 1757 Votre barbarie est inconcevable. Elle n'est pas de vous. Ce silence est un raffinement de cruauté qui n'a rien d'égal. On vous dira l'état où je suis depuis huit jours. Et vous aussi, et vous aussi, Sophie, vous me croyez un méchant. Ah Dieu, si vous le croyez, à qui donc en appellerais-je mais pourtant comment se fait-il que la vertu me soit si chère, que je sente en moi le cœur d'un homme de bien Non, quand je tourne les yeux sur le passé et que je vois quarante ans d'honneur à côté d'une mauvaise lettre, je ne puis désespérer de moi. Je n'affecterai point une fermeté dont je suis bien loin. Je me sens accablé de mes maux, mon âme est épuisée de douleur et d'ennui, je porte dans un cœur innocent toutes les horreurs du crime. Je ne fuis point des humiliations qui conviennent à mon infortune, et si j'espérais vous fléchir, j'irais, ne pouvant arriver jusqu'à vous, vous attendre à votre sortie, me prosterner au devant de vous, trop heureux d'être foulé au pied des chevaux, écrasé sous votre carrosse, et de vous arracher au moins un regret de ma mort. N'en parlons plus. La pitié n'efface point le mépris, et si vous me croyez digne du vôtre, il faut ne me regarder jamais. Ah. Méprisez-moi si vous le pouvez. Il me sera plus cruel de vous savoir injuste que moi, déshonoré, et j'implore de la vertu la force de supporter le plus douloureux des opprobres. Mais pour m'avoir ôté votre estime, faut-il renoncer à l'humanité? Méchant ou bon, quel bien attendez-vous de mettre un homme au désespoir? Voyez ce que je vous demande, et si vous n'êtes pire que moi, osez me refuser. Je ne vous verrai plus. Les regards de Sophie ne doivent tomber que sur un homme estimé d'elle, et l'œil du mépris n'a jamais souillé ma personne. Mais vous fûtes, après Saint Lambert, le dernier attachement de mon cœur. Ni lui, ni vous n'en sortirez jamais. Il faut que je m'occupe de vous sans cesse, et je ne puis me détacher de vous qu'en renonçant à la vie. Je ne vous demande aucun témoignage de souvenir. Ne parlez plus de moi, ne m'écrivez plus, oubliez que vous m'avez honoré du nom de votre ami et que j'en fus digne mais ayant à vous parler de vous, ayant à vous tenir le sacré langage de la vérité, que vous n'entendrez peut-être que de moi seul, que je sois sûr au moins que vous daignerez recevoir mes lettres, qu'elles ne seront point jetées au feu sans les lire, et que je ne perdrai pas ainsi les chers et derniers travaux auxquels je consacre le reste infortuné de ma vie. Si vous craignez d'y trouver le venin d'une âme noire, je consens qu'avant de les lire, vous les fassiez examiner, pourvu que ce ne soit pas par cet honnête homme qui se complait si fort à faire un scélérat de son ami. Que la première où l'on trouvera la moindre chose à blâmer, fasse à jamais révoquer la permission que je vous demande. Ne soyez pas surprise de cette étrange prière. Il y a si longtemps que j'apprends à aimer sans retour, que mon cœur y est tout accoutumé. À Madame Doudeteau, à l'Ermitage, le 10 novembre 1757. Je ne vois rien de vous, mon aimable et cher ami, qui n'augmente mon estime et mon attachement pour vous, et c'est ce qui m'arrive encore dans ce que vous exigez de moi vis-à-vis -vis de Madame Dépinay. Cependant, le bien même est quelquefois sujet à l'excès, et vous ne voudriez pas, par quelques vains ménagements, compromettre l'honneur de votre amie or pour bien juger du cas présent, trouvez bon que je vous rappelle ou que je vous expose exactement les faits vous avez vu l'étroite amitié qui a régné entre madame d'épinay et moi durant plusieurs années. vous avez vu tout ce que cette amitié lui a suggéré de zèle et de bonté pour moi, tout ce qu'elle a fait pour me rapprocher d'elle et me rendre mon sort agréable autant qu'il était possible. Vous connaissez trop bien mon cœur pour que j'aie besoin de vous dire les faits que toutes les avances du sien y produisirent. Il suffit que vous vous rappeliez ces conversations que nous avons eues autrefois à Épinay, vous et moi, sur son compte. Insensiblement, elle jeta sur son ami les liens de l'assujettissement. Non contente des temps où le désir de la voir m'attirait auprès d'elle, il fallait s'y rendre toutes les fois qu'elle était seule. Tous mes jours m'étaient prescrits, sans consulter ni mon amour pour ma retraite, ni le besoin où j'étais de travailler pour vivre, ni mes mots, ni ma répugnance à vivre dans la maison d'autrui, je n'osais presque plus sortir de la sienne. Mais le joug de l'amitié me fut toujours doux et je le portais sans murmure. L'été dernier, vous m'avez recherché. Pouvais-je moins faire que de répondre à vos avances, le moyen de vous connaître sans vous aimer Insensiblement, je me suis attaché à vous, et mes voyages d'Aubonne ne m'ont point été pardonnés. Madame d'Épinay n'a pu souffrir qu'ayant accoutumé de disposer de moi tout entier, vous lui dérobassiez une partie de mes soins. Ce n'est point un mouvement de vanité qui me donne cette idée, c'est le désir de trouver au moins quelque motif à son inconcevable conduite et de ne pas attribuer à la seule méchanceté. Elle jura de nous désunir, elle s'en vanta, et ses propres termes furent, Cela finira de manière ou d'autre. Incrédule à l'honneur, à l'amour, à la foi, à l'amitié sacrée, elle osa ternir par ses calomnies ce qu'il y a de plus respecté des hommes, et jeter d'indignes soupçons sur les deux personnes à qui elle devait le plus d'estime, sa sœur, son amie, elle s'efforça de jeter le trouble et la discorde dans mon petit ménage où la paix est le seul dédommagement de la pauvreté. Elle osa solliciter une personne qui m'est attachée à me quitter avec éclat et se réfugier chez elle. Je sens la colère et l'indignation se réveiller dans mon cœur à tant de souvenirs horribles. Achevons rapidement. Je sus. Le témoin qui me l'avait rapporté ne voulut point être compromis, je donnais ma foi, il a fallu la tenir, et ça a été mon plus cruel supplice d'être forcé de dissimuler et de cacher à une amie perfide le mépris qu'elle m'avait inspiré. Mais, le mépris se cache-t-il? Elle a trop vu le mien. Dans la crainte qu'elle n'eût fait pis que je n'en savais encore, je lui témoignais mes soupçons avec la hauteur et le dédain que les siens avaient mérité les larmes, les étreintes de l'amitié, les protestations furent sa justification. Je la crus justifiée au moins sur ce point, et pensais qu'on m'avait grossi le reste, quoique dans ce temps même votre visible refroidissement ne dût que trop me rendre tous mes ombrages. Je pris le parti qui convenait à ma franchise, j'écrivis à votre ami, j'ai l'âme trop haute et je pense trop bien de la sienne pour daigner relever de basses calomnies. Je n'ai point été trompé dans mon attente, ni lui dans son estime, ni vous dans votre amitié. Nos trois cœurs sont faits pour s'aimer et s'honorer, non pour se mépriser ni pour se craindre. Cependant les manèges de madame d'Epinay ont continué jusqu'au moment de son départ. Vous ne m'avez pas écrit un billet qu'on ait accusé. Nous n'avons pas fait une promenade dans son parc qu'on ait critiqué. Le bonheur a voulu qu'on s'est adressé pour cela aux plus sûrs témoins de votre conduite et de la mienne, et mon repos n'en a point été troublé. Instruit de tout, chaque jour j'étais prêt d'éclater. Je me suis contenu avec peine jusqu'au moment de son départ. Voilà, madame, indépendamment de tout autre motif, la personne qu'on m'obligeait à accompagner à Genève. Mes amis ont pris sur moi un tel empire que je ne puis plus faire un pas sans leur rendre compte de mes raisons. « Il faut désormais que ma vie se passe en apologie. Vous avez vu l'indiscret billet de Diderot. Il fallait y répondre. Je choisis le meilleur ami de Mme Dépinay et à ce que je pensais le plus discret des miens pour lui exposer celle de mes raisons que je pouvais dire. Vous pouvez croire qu'avec ma raison secrète et l'humeur que Diderot m'avait donnée, cette lettre n'était pas bien tendre. Cependant, je défie que dans toute sa sécheresse, on y trouve un seul mot offensant pour Madame Dépinay. » On y voit seulement que je n'ai pas pour elle une amitié bien vive et que je ne me crois pas obligé à une grande reconnaissance. Quant aux emportements puérils qui y règnent, ils regardent seulement la gêne de ma situation et ma répugnance à la servitude. Rien d'applicable à Madame Dépinay. »« On me répond là-dessus un billet provisionnel équivoque et louche qui ressemble fort au style d'un méchant homme qui médite sourdement un mauvais coup. Puis, après le départ, vient une seconde lettre. Non, le plus scélérat des hommes n'en reçut jamais de semblable. Eh bien, madame, c'est à moi qu'elle est adressée. Pour savoir maintenant si je dois demeurer à l'ermitage ou non, voici ce qu'il faut considérer. D'abord, j'y suis dans la maison d'une femme que je ne puis ni aimer ni estimer et qui m'a voulu perdre. Il me semble que tout est déjà dit. Mais poursuivons l'auteur de la lettre en question me disait il y a quelque temps il me semble que si vous étiez mécontent de madame d'épinay vous ne resteriez pas à l'ermitage son avis à lui-même est donc parfaitement conforme au mien or jugez si depuis le départ de madame d'épinay j'ai lieu d'être plus content d'elle premièrement elle m'avait promis de m'écrire de paris elle n'en a rien fait je lui ai de plus écrit un billet qui n'a rien d'offensant, elle n'y a point répondu. Je lui ai demandé des nouvelles de son fils, elle ne m'en a point donné. Elle est dans mon pays et ne me donne pas la moindre nouvelle, ni de son voyage, ni de son arrivée. J'ai encore un autre indice que l'infâme lettre qui m'a été écrite a été concertée avec elle et que la mienne lui a été montrée, en ce que je demandais si, continuant de payer le jardinier, je ferais bien de passer l'hiver à l'ermitage pour ne point afficher une rupture. Pour toute réponse, on est venu de la part de Monsieur dépinay M d'Épinay m'offrir le remboursement des gages du jardinier. Assurément, si après tout cela j'attends un congé en meilleure forme, c'est sans doute qu'on me vienne mettre dehors à coups de bâton. Une ancienne amitié même éteinte, a des droits que je respecterai toujours. J'ai résolu de garder un éternel silence sur l'odieuse conduite de madame d'Épinay avec moi. Mes griefs contre elle resteront concentrés entre moi et mes intimes amis dont je veux conserver l'estime. Je sais donc bien que tout le monde me blâmera, mais qu'importe. Il n'est pas question de ce qu'on dira, mais de ce que je dois faire. Je ne sais comment vous pouvez me conseiller de rester quand la voix intérieure qui ne me trompe jamais me crie que chaque jour que je reste à l'ermitage est une bassesse qu'il faut me reprocher. Vous voulez que j'écrive à madame d'Épinay et que lui écrirai-je? Dictez-moi donc ma lettre, je vous en prie. N'abusez point de votre pouvoir jusqu'à me forcer de choisir entre mon honneur et votre volonté. Voici pourtant ce que le désir de vous complaire me fait accorder en murmurant et contre le cri de ma conscience. J'ai fait écrire à madame d'Épinay par cahuète pour avoir ses ordres au sujet des meubles qu'il ne faut pas laisser ici exposés aux voleurs, et j'ai promis de rester jusqu'au temps nécessaire pour que la réponse arrive. Si, avec cette réponse, il vient pour moi une lettre honnête de madame d'Épinay pour m'engager à passer ici l'hiver, je consens d'y rester. Je consens d'y rester encore, même sans lettre de sa part, pourvu que vous lui écriviez encore très positivement que vous l'avez exigé sous peine de disgrâce, que j'y reste à contre-coeur et par seule déférence pour vous. Alors, en faisant un voyage au printemps, je sortirai d'ici sans éclat. Choisissez entre ces deux conditions, ou laissez-moi partir comme je devrais déjà l'avoir fait. Au reste, je dois vous avertir que loin qu'il me reste ni agitation ni colère, je me sens d'une faiblesse, d'un accablement qui m'ôte la force de penser, d'agir, et qui me fait trembler à la seule idée d'un délogement. Ainsi, croyez que je n'ai point actuellement à me défier de mes résolutions, et qu'au contraire, si je me sens encore la force de les tenir, c'est parce que l'honneur est la dernière chose qui s'éteint chez un honnête homme. Je n'ai point de nouvelles de Diderot. Prompt à quereller ses amis, il les laisse au milieu de leur peine boire à loisir la coupe de l'affliction. Je ne puis plus supporter l'état où il me tient et je lui enverrai samedi mademoiselle Levasseur elle ira aussi savoir de vos nouvelles et prendre votre réponse adieu ma chère amie et mon unique consolatrice à madame d'Épinay, à l'ermitage le 23 novembre 1757 si l'on mourait de douleur je ne serais pas en vie mais enfin, j'ai pris mon parti. L'amitié est éteinte entre nous, madame. Mais celle qui n'est plus garde encore des droits que je sais respecter. Je n'ai point oublié vos bontés pour moi, et vous pouvez compter de ma part sur toute la reconnaissance qu'on peut avoir pour quelqu'un qu'on ne doit plus aimer. Toute autre explication serait inutile. J'ai pour moi ma conscience et vous renvoie à la vôtre. J'ai voulu quitter l'ermitage et je le devais, mais on prétend qu'il faut que j'y reste jusqu'au printemps. Et puisque mes amis le veulent, j'y resterai si vous y consentez. Cinquième partie. Le commerce des grands. 1758-1762. À Madame Doudeteau. Ce 5 janvier 1758. Je continuais vos copies, madame, quand j'ai été arrêté par une réflexion qu'il faut que je vous communique. Je commencerai par vous dire que le style équivoque et louche de vos dernières lettres ne m'a point échappé. J'ai tout fait pour vous donner occasion de vous expliquer. Je vous ai demandé des éclaircissements. Je vous ai prié d'en demander à votre ami. Vous avez tout éludé. La franchise de vous autres gens du monde est de ne jamais dire ce que vous pensez qu'avec précaution, réserve, poliment, à double entente, à demi-mot. Ma puérile franchise à moi, comme vous l'appelez vous-même, est d'interpréter tout cela dans mon langage rustique et de répondre sans détour à tout ce qu'on me fait entendre adroitement. Puis donc qu'au lieu de vous honorer de mon amitié, vous en avez honte, je la retire pour ne pas vous en laisser rougir plus longtemps. Méprisez-moi désormais si vous pouvez. Je ne m'en enfoncerai plus. Je vous déclare que dès cet instant, je ne vois plus en vous que Madame la Comtesse, ni en lui avec tout son génie que Monsieur le Marquis. Et c'est être plus descendu que vous ne pensez. Ce n'est pas que j'aie oublié ce que je vous dois, ni les bienfaits que j'ai reçus de vous. Ces bienfaits ne sont ni de l'or ni de l'argent dont je vous aurais su peu de gré et dont je ne me souviendrai plus aujourd'hui. Mais quand mon cœur gonflé d'ennui trouvait des consolations près de vous, quand vous me renvoyiez dans le sein de mon ami, quand vous me parliez avec tant de plaisir du vôtre dans d'aimables promenades, quand je m'en trouvais plus heureux d'être homme de bien pour mériter votre estime, quand, indignement outragé et abandonné pour ne vouloir pas être le valet d'une femme méprisable, vous seul en dernier lieu souteniez mon courage abattu, c'était là des bienfaits précieux qui me rendaient la vie douce et délicieuse. Ah, vous n'étiez pas comtesse alors, et vous me sembliez malgré vos faiblesses un ange du ciel qui venait ranimer en moi la constance et la vertu. Que vous avez changé. Mais ce cœur que les âmes basses et vénales osent traiter d'ingrat ne change point. S'il doit oublier qui le méprise, il sait toujours estimer et honorer le mérite. Il ne perd point le tendre souvenir des bienfaits reçus. Enfin, quoique je sois résolu de ne jamais chercher à vous voir, la seule reconnaissance est encore un sentiment si doux que si je vous revois jamais, ce ne sera point sans plaisir. Voilà ce qu'il fallait d'abord que vous suciez. Venons maintenant à ce que j'avais à vous dire en commençant. Je vois Manifestement, par vos lettres, que la chose à laquelle vous donnez le plus grand prix dans le monde est l'argent. Vous n'admettez pour bienfaits dignes de reconnaissance que ceux qui se font par son moyen, ou du moins vous ne mettez nulle autre espèce en comparaison avec celle-là. Le riche est l'unique dispensateur des bienfaits, à votre compte, et nous sommes privés, nous autres pauvres, du plaisir d'exercer jamais le plus doux acte de l'humanité. Moi, au contraire, je sépare toujours les possessions d'avec la personne. Je ne vois pas que celui qui donne beaucoup d'argent donne rien du sien, au lieu que celui qui donne son temps, sa liberté, ses sentiments, ses talents, ses soins, se donne vraiment lui-même, et tout ce qui constitue son être, son sort et sa vie. Il tire pour ainsi dire de sa propre substance tout le bien qu'il fait à autrui. Pour raisonner conséquemment, vous ne devez pas trouver le pélican un fort tendre père, attendu qu'il ne nourrisse ses petits que de son sang, au lieu que les autres oiseaux nourrissent les leurs à bien plus grand prix de ce qu'ils ramassent. Pour moi, dans cet échange de bienfaits, quand l'un des deux aurait donné tout l'or de l'univers et que l'autre ne donnerait qu'une heure de sa vie, je tiens que le premier ne saurait être quitte envers lui. Appliquons, madame, nos principes aux copies que je fais pour vous. Je vois qu'il n'y a qu'un moyen de nous accorder sur le prix que nous leur donnerons. C'est que je n'en reçoive aucun paiement. Car alors je vous devrais une chose très douce, qui est d'avoir employé mon temps à vous servir. Mais sitôt que vous me voudrez payer en comparant la chose reçue avec la chose donnée, et m'ayant donné de l'argent pour mon temps, vous prétendrez que je serai fort en reste avec vous. Et moi, je prétendrai tout le contraire car je puis gagner de mille autres manières autant d'argent que vous m'en aurez donné, mais quoi que vous fassiez, il vous est impossible de me jamais rendre aucune des heures que j'aurais employées pour vous. Ainsi, madame, voyant que nous ne saurions nous, nous accorder en rien sur l'estimation des choses, et ne voulant pas aussi passer pour ingrat envers vous, je suspends mon travail jusqu'à votre réponse, ou trouvez bon que j'ai le plaisir de vous offrir mes copies, ou cherchez un autre copiste. À Madame Doudeteau, à Montmorency, le 10 janvier 1758. Il n'est jamais permis d'être malhonnête. Ma lettre l'était. J'en suis justement puni. Je la désavouais même en l'écrivant. Vous ne l'ignorez pas, mais, contente d'y trouver le prétexte de rupture que vous cherchiez depuis longtemps, en violant la foi de l'amitié, vous avez pu mettre les procédés de votre côté, tandis que les sentiments étaient du mien. Tel est l'ordinaire partage des gens du monde et des solitaires. Les apparences me condamnent, j'en conviens, mais j'en appelle à votre cœur. Il connaît le mien, qu'il me juge. J'ai dû m'attendre à ce qui m'arrive. Il y a longtemps qu'on me l'a prédit. Il y a longtemps même que j'en pressens l'accomplissement. Et voilà le seul de mes maux qui a rendu tous les autres insupportables. Si vous aviez si peu de temps à donner au commerce de notre amitié, pourquoi donc en temps perdre à la former J'étais heureux et tranquille quand vous vintes troubler mon repos. Vous avez bien pu trouver tout le temps qu'il fallait pour me rendre misérable. Vous n'en avez plus trouvé pour me consoler. Si j'ai mal mérité de vous en quelque chose, si la plus simple amitié connaît quelque devoir que je n'ai pas rempli, si votre repos ne me fut pas toujours plus cher que le mien, si tous mes malheurs même n'attestent pas la force et la pureté de mon attachement pour vous, daignez le dire, et je me tais. Comment les deux billets que j'ai trouvés joints aux vôtres vous ont-ils permis de l'écrire avec tant de sécheresse? Comment ne vous êtes-vous pas dit en les revoyant s'il était moins sensible à mon bonheur et à ma gloire, il serait encore l'ami de madame d'Épinay? Mais vous avez attendu pour m'ôter votre amitié qu'il ne me restât plus de preuve à vous donner de la mienne. Vous vous trompez pourtant il m'en reste une plus forte et plus digne de moi que toutes les autres. C'est de vous conserver toute ma vie cette même amitié que vous dédaignez et de la rendre indépendante de toutes les marques d'indifférence et de mépris que je puis recevoir de vous. Il est toujours doux d'être sensible, et mon cœur désormais fermé à tout nouvel attachement n'en nourrira qu'avec plus de charme le dernier qu'il a formé. De tous les amis dont vous me parlez, il ne m'en reste qu'un, et la raison en est bien simple, c'est que je n'en eus jamais d'autres, car celui-là seul a résisté à mon adversité, et tout le reste s'est évanoui comme le faux or à la coupelle. Eh bien, je l'aimerai et il m'aimera. Je vous aimerai et vous ne m'aimerez point. Si le premier sentiment partagé me rend plus heureux, le dernier me rendra plus digne de l'être, en nourrissant au fond de mon âme le sublime désintéressement dont elle est capable. Oui, Sophie, vous m'êtes plus chère que jamais, et mon cœur veut nourrir jusqu'à mon dernier soupir le vif et pur attachement qu'il a conçu pour vous. N'en soyez point alarmée, mon amitié ne vous sera plus importune, et comme elle n'exige ni n'attend plus rien de vous, elle ne causera plus entre nous de querelles, et ne vous coûtera aucun soin. Je ne renonce pas au plaisir de vous écrire. Il est la seule consolation qui me reste. Mais comme vous êtes quitte avec les bienséances et ne serez point obligé à répondre, rien ne vous empêchera, si mes lettres vous ennuient, de les jeter au feu sans les lire. Que si vous êtes importuné même de les recevoir, vous pouvez me le dire encore, et je suis prêt à vous sacrifier cette dernière consolation. Car comme ce n'est plus de votre gré que je suis votre ami, je ne veux plus que cette amitié vous donne aucune sorte de gêne. Peut-être en serez-vous plus tranquille en m'oubliant tout à fait, et moi, j'en serai plus content en ne vous déplaisant en rien. Il est bien étrange que vous me parliez encore de la lettre à Voltaire. Comment en vient-on là quand on fut ami Bien loin que ma conduite en cette occasion dût vous déplaire, elle était un devoir envers vous. Cette lettre n'avait pas été communiquée à vous seule, elle l'avait été à Madame d'Épinay et à un certain homme. Sur le bruit qu'elle se répandait, je résolus de remonter à la source pour constater l'infidélité. Mais je dus vous en parler auparavant, à vous en particulier, de peur de vous compromettre, si malheureusement la communication venait de vous, ce qui eût été une faiblesse et non pas un crime. Mais, sur le premier mot que vous m'en dites, il ne me resta pas le moindre doute, et j'étais si persuadé que vous n'aviez aucune part à cette indiscrétion, que j'allais travailler à en faire la honte aux coupables en me justifiant envers M. de Voltaire, quand j'appris que la lettre en question n'était pas la mienne, mais celle d'un autre genevois nommé M. Vernet. Réparez donc votre injustice envers moi. Je ne connais point d'amitié sans estime et sans confiance, et vous savez si j'en ai pour vous. Je vous crois capable de faiblesse et de légèreté, mais jamais d'infidélité ni de mensonge. Vous devez me connaître assez pour savoir que si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas. Au nom du ciel, laissez moi oublier les indignités que je vous ai écrites au sujet des copies. Si vous croyez que rien de semblable soit sorti de mon cœur, je déclare franchement que vous devez ne me regarder jamais. Dites-moi que vous le croyez et je me condamne. Ah Sophie, Sophie, si je pouvais perdre votre amitié sans douleur, je vous dirais moins d'injures et vous outragerais davantage. À madame la comtesse d'Oudetot, le 11 janvier 1758. Votre lettre m'a donné le plus pur, le plus vrai plaisir que j'ai goûté de ma vie. Ah. Si vous m'eussiez toujours écrit ainsi, que de tourments vous m'eussiez épargné. J'ai mis hier une lettre à la poste par laquelle vous connaîtrez mes vrais sentiments. Je serais inconsolable si votre retour eût prévenu le mien. Croyez moi, chère Sophie, mon cœur est fait pour vous aimer, il en est digne, et vous serez toujours, après la vertu, ce qu'il aura de plus cher au monde. Soyons amis pour mon bonheur et peut-être pour le vôtre. Si mon cœur ne me trompe pas, nous en deviendrons meilleurs tous les deux. Je me conforme entièrement à ce que vous exigez. Je ne vous écrirai plus sans votre permission et seulement par la voie que vous m'indiquerez. Si vous gardez un long silence, je pourrais être en peine sur votre santé ou sur votre repos, mais après la démarche que vous venez de faire, je jure de ne l'être de ma vie sur votre amitié et d'emporter au tombeau celle que je vous ai vouée. Adieu, ma digne et chère amie. La crise est faite, les indignités que j'ai souffertes ont fait la révolution dont j'avais besoin. Me voilà rendue à moi même et à mes maximes. Trois ans d'esclavage m'avaient avili l'âme. J'avais pris sans y songer la plupart des préjugés du monde. Grâce au ciel, ils sont effacés et je puis rendre aux peu d'amis qui me restent un cœur digne de leur estime et qui ne se démentira plus. À Monsieur Diderot, le 2 mars 1758. Il faut, mon cher Diderot, que je vous écrive encore une fois en ma vie. Vous ne m'en avez que trop dispensé. Mais le plus grand crime de cet homme que vous noircissez d'une si étrange manière est de ne pouvoir se détacher de vous. Mon dessein n'est point d'entrer en explication dans ce moment ci sur les horreurs que vous m'imputez. Je vois que cette explication serait à présent inutile, car quoique n'est bon avec une âme franche, vous avez pourtant un malheureux penchant à mésinterpréter les discours et les actions de vos amis. Prévenu contre moi comme vous l'êtes, vous tourneriez en mal tout ce que je pourrais dire pour me justifier, et mes plus ingénues explications ne feraient que fournir à votre esprit subtil de nouvelles interprétations à ma charge. Non, Diderot, je sens que ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Je veux d'abord proposer à votre bon sens des préjugés plus simples, plus vrais, mieux fondés que les vôtres, et dans lesquels je ne pense pas au moins que vous puissiez trouver de nouveaux crimes. Je suis un méchant homme, n'est-ce pas Vous en avez les témoignages les plus sûrs, cela vous est bien attesté. Quand vous avez commencé à l'apprendre, il y avait seize ans que j'étais pour vous un homme de bien, et quarante ans que je l'étais pour tout le monde. En pouvez-vous dire autant de ceux qui vous ont communiqué cette belle découverte? Si l'on peut porter à faux si longtemps le masque d'un honnête homme, quelle preuve avez-vous que le masque ne couvre pas leur visage aussi bien que le mien? Est-ce un moyen bien propre à donner du poids à leur autorité que de charger en secret un homme absent, hors d'état de se défendre? Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je suis un méchant, mais pourquoi le suis-je? Prenez bien garde, mon cher Diderot, cela mérite votre attention. On n'est pas malfaisant pour rien. S'il y avait quelque monstre ainsi fait, il n'attendrait pas quarante ans à satisfaire ses inclinations dépravées. Considérez donc ma vie, mes passions, mes goûts, mes penchants. Cherchez, si je suis méchant, quel intérêt m'a pu porter à l'être. Moi qui, pour mon malheur, portais toujours un cœur trop sensible, que gagnerais-je à rompre avec ceux qui m'étaient chers à quelle place ai-je aspiré À quelle pension À quels honneurs m'a-t-on vu prétendre Quel concurrent ai-je à écarter Comment peut-il revenir de mal faire Moi qui ne cherche que la solitude et la paix, moi dont le souverain bien consiste dans la paresse et l'oisiveté, moi dont l'indolence et les mots me laissent à peine le temps de pourvoir à ma subsistance, à quel propos, à quoi bon mirais je plonger dans les agitations du crime et m'embarquer dans l'éternel manège des scélérats Quoi que vous en disiez, on ne fuit point les hommes quand on cherche à leur nuire. Le méchant peut méditer ses coups dans la solitude, mais c'est dans la solitude qu'il les porte. Un fourbe a de l'adresse et du sang-froid. Un perfide se possède et ne s'emporte point. Reconnaissez-vous en moi quelque chose de tout cela? Je suis emporté dans la colère et souvent étourdi de sang-froid. Ces défauts font-ils le méchant? Non, sans doute. Mais le méchant en profite pour perdre celui qui les a. Je voudrais que vous puissiez aussi réfléchir un peu sur vous même. Vous vous fiez à votre bonté naturelle mais savez vous à quel point l'exemple et l'erreur peuvent la corrompre? N'avez vous jamais craint d'être entouré d'adulateurs adroits qui n'évitent de louer grossièrement en face que pour s'emparer plus adroitement de vous sous l'appât d'une feinte sincérité? Quel sort pour le meilleur des hommes d'être égaré par sa candeur même, et d'être innocemment, dans la main des méchants, l'instrument de leur perfidie? Je sais que l'amour-propre se révolte à cette idée, mais elle mérite l'examen de la raison. Voilà des considérations que je vous prie de bien peser. Pensez y longtemps avant que de me répondre. Si elles ne vous touchent pas, nous n'avons plus rien à nous dire. Mais si elles font quelque impression sur vous, alors nous entrerons en éclaircissement. Vous retrouverez un ami digne de vous et qui peut-être ne vous aura pas été inutile. « J'ai pour vous exhorter à cet examen un motif de grand poids, et ce motif le voici. »« Vous pouvez avoir été séduit et trompé. »« Cependant votre ami gémit dans sa solitude, oublié de tout ce qui lui était cher. »« Il peut y tomber dans le désespoir, y mourir enfin, maudissant l'ingrat dont l'adversité lui fit enverser de larmes et qui l'accable indignement dans la sienne. »« Il se peut que les preuves de son innocence vous parviennent enfin. » Que vous soyez forcé d'honorer sa mémoire et que l'image de votre ami mourant ne vous laisse pas des nuits tranquilles. Diderot, pensez-y, je ne vous en parlerai plus. Printemps 1758 un jeune homme. Vous ignorez, monsieur, que vous écrivez à un pauvre homme accablé de mots et de plus fort occupé qui n'est guère en état de vous répondre et qui le serait encore moins d'établir avec vous la société que vous lui proposez. Vous m'honorez en pensant que je pouvais vous y être utile et vous êtes louable du motif qui vous l'a fait désirer. Mais sur le motif même, je ne vois rien de moins nécessaire que de venir vous établir à Montmorency. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher si loin les principes de la morale. Rentrez dans votre cœur et vous les y trouverez. Et je ne pourrai rien vous dire à ce sujet que ne vous dise encore mieux votre conscience quand vous voudrez la consulter. La vertu, monsieur, n'est pas une science qui s'apprend avec tant d'appareils. Pour être vertueux, il suffit de vouloir l'être. Et si vous avez bien cette volonté, tout est fait. Votre bonheur est décidé. S'il m'appartenait de vous donner des conseils, le premier que je voudrais vous donner serait de ne point vous livrer à ce goût que vous dites avoir pour la vie contemplative, et qui n'est qu'une paresse de l'âme, condamnable à tout âge et surtout au vôtre. L'homme n'est point fait pour méditer, mais pour agir. La vie laborieuse que Dieu nous impose n'a rien que de doux au cœur de l'homme de bien, qui s'y livre en vue de remplir son devoir et la vigueur de la jeunesse ne vous a pas été donnée pour la perdre à d'oisives contemplations. Travaillez donc, monsieur, dans l'état où vous ont placé vos parents et la Providence. Voilà le premier précepte de la vertu que vous voulez suivre. Et si le séjour de Paris, joint à l'emploi que vous remplissez, vous paraît d'un trop difficile alliage avec elle, faites mieux, monsieur, retournez dans votre province, allez vivre dans le sein de votre famille, servez, soignez vos vertueux parents, c'est là que vous remplirez véritablement les soins que la vertu vous impose. Une vie dure est plus facile à supporter en province que la fortune à poursuivre à Paris, surtout quand on sait, comme vous n'ignorez pas, que les plus indignes manèges y font plus de fripons gueux que de parvenus. Vous ne devez point vous estimer malheureux de vivre comme fait monsieur votre père. Et il n'y a point de sort que le travail, la vigilance, l'innocence et le contentement de soi ne rendent supportable quand on s'y soumet en vue de remplir son devoir. Voilà monsieur des conseils qui valent tous ceux que vous pourriez venir prendre à Montmorency. Peut-être ne seront-ils pas de votre goût, et je crains que vous ne preniez pas le parti de les suivre. Mais je suis sûr que vous vous en repentirez un jour. Je vous souhaite un sort qui ne vous force jamais à vous en souvenir. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations très humbles. À monsieur d'Alembert, à Montmorency, le 25 juin 1758. J'ai dû, monsieur, répondre à votre article sur Genève. Je l'ai fait et je vous ai même adressé cet écrit. Je suis sensible au témoignage de votre souvenir et à l'honneur que j'ai reçu de vous en plus d'une occasion. Mais vous nous donnez un conseil pernicieux. Et si mon père en avait fait autant, je n'aurais pu ni dû me taire. J'ai tâché d'accorder ce que je vous dois avec ce que je dois à ma patrie quand il a fallu choisir. J'aurais fait un crime de balancer. Si ma témérité vous offense, vous n'en serez que trop vengé par la faiblesse de l'ouvrage. Vous y chercherez en vain les restes d'un talent qui n'est plus et qui ne se nourrissait peut-être que de mon mépris pour mes adversaires. Si je n'avais consulté que ma réputation, j'aurais certainement supprimé cet écrit. Mais il n'est pas ici question de ce qui peut vous plaire ou m'honorer. En faisant mon devoir, je serai toujours assez content de moi et assez justifié près de vous. Monsieur Ray, libraire à Amsterdam, à Montmorency, le 8 juillet 1758. Je n'ai reçu qu'avant-hier, mon cher Ray, votre paquet adressé à M. Coindet, contenant les deux feuilles M et N, la préface et un mot de lettre du 28. À l'égard de la feuille L que vous dites m'avoir envoyée par M. Dupin, elle ne m'est point parvenue, et si vous y aviez joint quelque chose par écrit qu'il importe que je sache, vous ferez bien de me le répéter. J'ai bien peur que vous n'ayez confondu monsieur Dupin, fermier général, avec monsieur Dupin de Chenonceau, aussi fermier général. Si vous aviez suivi exactement l'adresse que je vous ai envoyée, cela ne serait pas arrivé. J'enverrai demain à Paris express pour m'informer de ce paquet. Ne vous pressez pas de me renvoyer la feuille L jusqu'à ce que je vous marque par un autre courrier si en effet la première est perdue sans retour. Voici de nouvelles corrections non moins indispensables que les précédentes, mais j'ai moins de regrets à votre peine depuis que je vois que vos fautes viennent d'avoir voulu corriger les miennes, et de vous être mis en tête qu'on parle mieux français à Amsterdam qu'à Paris. Au reste, afin que vous ne m'accusiez ni d'humeur ni d'entêtement, je veux bien vous rendre raison des leçons que je suis forcé de rétablir. 1. Préface page 18, pénultième ligne, accueillerez, il faut accueillirait comme j'avais mis précédemment, parce que c'est l'usage des gens qui parlent bien, et puis parce que l'analogie le demande, attendu qu'on ne dit pas vous faillerez et vous cueillerez. Enfin, parce que la pénultième syllabe de ce mot doit être appuyée par un accent et qu'un e muet n'en saurait comporter. Changez donc cette e en i. Cette faute est si choquante à la place où elle est que, si malheureusement la préface était déjà tirée, il faudrait absolument un carton pour rétablir ce mot. Comme j'espère qu'elle ne l'est pas, je vous prie aussi, même page, ligne 6, de mettre simplement lecteur au singulier et d'ôter l'eau. Je voudrais bien encore que vous puissiez faire en sorte que la citation latine de la page 16 n'eût pas besoin de tourner. Deuxièmement, page 186 ligne 5 en remontant Femme. Je n'avais point mis cette S, ôtez-la. Vous me direz qu'elle est fort indifférente et vous avez raison quant au sens. Mais outre que le singulier est plus élégant, ce pluriel ajoute dans la phrase une syllabe qui en gâte absolument l'harmonie, et l'harmonie me paraît d'une si grande importance en fait de style que je la mets immédiatement après la clarté, même avant la correction. 3. Page 181, ligne 4. J'avais mis Il faudra. Vous avez mis il faudrait. Ce changement non plus n'altère pas le sens, et c'est tant pis, car on ne le prendra pas pour une faute d'impression. Or, voyez quelle chaîne de solécisme il étend sur les temps qui suivent. Rétablissez donc il faudra, comme vous pourrez, et ne vous en prenez qu'à vous-même de la peine que je vous donne malgré moi. Quand l'ouvrage sera fini, je vous enverrai la note des fautes dont je ne vous parle pas, et vous en serez étonné. Vous avez tort de m'envoyer vos paquets par la poste à vos frais, puisque ces paquets n'étant pas des épreuves, j'aurais attendu patiemment, comme je vous l'ai marqué, que vous trouvassiez quelque occasion pour me les faire tenir. Heureusement nous approchons de la fin, et je ne pense pas qu'il vous reste encore beaucoup d'envois à me faire par la poste. Quand vous serez prêt à faire vos envois, je vous marquerai comment je souhaite de partager mes exemplaires. En attendant, je vous prie de ne pas oublier monsieur d'Alembert, avant que l'ouvrage paraisse, ni s'il y a moyen, M. de Saint-Lambert à Nancy quand il paraîtra. Adieu, mon cher Ray, je vous embrasse de tout mon cœur. À M. Romilly, étudiant à Genève, à Montmorency le 6 février 1759. On ne saurait aimer les pères sans aimer les enfants qui leur sont si chers. Ainsi, monsieur, je vous aimais sans vous connaître, et vous croyez bien que ce que je reçois de vous n'est pas propre à relâcher cet attachement. J'ai lu votre Ode. J'y ai trouvé de l'énergie, des images nobles, et quelquefois des vers heureux. Mais votre poésie paraît gênée, elle sent la lampe et n'a pas acquis la correction. Vos rimes, quelquefois riches, sont rarement élégantes, et le mot propre ne vous vient pas toujours. Mon cher Romy, quand je paie les compliments par des vérités, je rends mieux que ce qu'on me donne. Je vous crois du talent, et je ne doute pas que vous ne vous fassiez honneur dans la carrière où vous entrez. J'aimerais pourtant mieux pour votre bonheur que vous eussiez suivi la profession de votre digne père, surtout si vous aviez pu vous y distinguer comme lui. Un travail modéré, une vie égale et simple, la paix de l'âme et la santé du corps qui sont le fruit de tout cela, valent mieux pour vivre heureux que le savoir et la gloire. Du moins en cultivant les talents des gens de lettres, n'en prenez pas les préjugés. N'estimez votre état que ce qu'il vaut et vous en vaudrez davantage. Je vous dirai que je n'aime pas la fin de votre lettre. Vous me paraissez juger trop sévèrement les riches. Vous ne songez pas qu'ayant contracté dès leur enfance mille besoins que nous n'avons point, les réduire à l'état de pauvres, ce serait les rendre plus misérables qu'eux. Il faut être juste envers tout le monde, même envers ceux qui ne le sont pas pour nous. Eh, monsieur, si nous avions les vertus contraires aux vices que nous leur reprochons, nous ne songerions pas même qu'ils sont au monde, et bientôt ils auraient plus besoin de nous que nous deux. En, encore un mot, et je finis. Pour avoir le droit de mépriser les riches, il faut être économe et prudent soi-même, afin de n'avoir jamais besoin de richesse. Adieu, mon cher Romilly, je vous embrasse de tout mon cœur. À Monsieur le maréchal de Luxembourg, à Montmorency, le 30 avril 1759. Monsieur, je n'ai oublié ni les grâces dont vous m'avez comblé, ni l'engagement auquel le respect et la reconnaissance ne m'ont pas permis de me refuser. Je n'ai perdu ni la volonté de tenir ma parole, ni le sentiment avec lequel il me convient d'accepter l'honneur que vous m'avez fait. Mais, monsieur le maréchal, cet engagement ne pourrait être que conditionnel, et dans l'extrême distance qu'il y a de vous à moi, ce serait de ma part une témérité inexcusable d'oser habiter votre maison sans savoir si j'y serais vu de vous et de madame la maréchale avec la même bienveillance qui vous a porté à me l'offrir. Vos bontés m'ont mis dans une perplexité qu'augmente le désir de n'en pas être indigne. Je conçois comment on rejette avec un respect froid et repoussant les avances des grands qu'on n'estime pas, mais comment, sans m'oublier, en userais-je avec vous, monsieur, que mon cœur honore, avec vous que je rechercherais si vous étiez mon égal N'ayant jamais voulu vivre qu'avec mes amis, je n'ai qu'un langage, celui de l'amitié, de la familiarité. Je n'ignore pas combien de mon état au vôtre il faut modifier ce langage. Je sais que mon respect pour votre personne ne me dispense pas de celui que je dois à votre rang, mais je sais mieux encore que la pauvreté qui s'avilit devient bientôt méprisable. Je sais qu'elle a aussi sa dignité, que l'amour même de la vertu l'oblige de conserver. Je suis ainsi toujours dans le doute de manquer à vous ou à moi d'être familier ou rampant, et ce danger même qui me préoccupe m'empêche de rien faire ou de rien dire à propos. Déjà, sans le vouloir, je puis avoir commis quelque fautes, et cette crainte est bien raisonnable à un homme qui ne sait point comment on doit se conduire avec les grands, qui ne s'est point soucié de l'apprendre, et qui n'aura qu'une fois en sa vie regretté de ne le pas savoir. Pardonnez donc, monsieur le maréchal, la timidité qui me fait hésiter à me prévaloir d'une grâce à laquelle je devais si peu m'attendre, et dont je voudrais ne pas abuser. Je n'ai point, quant à moi, à changé de résolution, mais je crains de vous avoir donné lieu de changer de sentiment sur mon compte. Si M. Chasseau m'apprend de votre part et de celle de Madame la Maréchale que je suis toujours le bienvenu, vous verrez, par mon empressement à profiter de vos grâces, que ce n'est pas la crainte d'être ingrat qui m'a fait balancer. Soit que j'habite votre maison et que je sois admis quelquefois auprès de vous, Soit que je reste dans la distance qui me convient, les bontés dont vous m'avez honoré et la manière dont j'ai tâché d'y répondre ont mis désormais un intérêt commun entre nous. L'estime réciproque rapproche tous les états. Quelque élevé que vous soyez, quelque obscur que je puisse être, la gloire de chacun des deux ne doit plus être indifférente à l'autre. Je me dirai tous les jours de ma vie. Souviens-toi que Monsieur le Maréchal duc de Luxembourg t'honora de sa visite et vint s'asseoir sur ta chaise de paille au milieu de tes pots cassés. Ce ne fut ni pour ton nom ni pour ta fortune, mais pour quelque réputation de probité que tu t'es acquise. Ne le fais jamais rougir de l'honneur qu'il t'a fait. Daignez Monsieur le Maréchal vous dire aussi quelquefois, il est dans le patrimoine de mes pères un solitaire qui s'intéresse à moi qui s'attendrit au bruit de ma bénéficence, qui joint les bénédictions de son cœur à celles des malheureux que je soulage, et qui m'honore, non parce que je suis grand, mais parce que je suis bon. Recevez, monsieur le maréchal, les humbles témoignages de ma reconnaissance et de mon profond respect. À monsieur le maréchal de Luxembourg, au petit château, le 27 mai 1759. Monsieur, votre maison est charmante. Le séjour en est délicieux. Il le serait plus encore si la magnificence que j'y trouve et les attentions qui m'y suivent me laissaient un peu moins apercevoir que je ne suis pas chez moi. À cela près, il ne manque au plaisir avec lequel je l'habite que celui de vous en voir le témoin. Vous savez, monsieur le maréchal, que les solitaires ont tous l'esprit romanesque. Je suis plein de cet esprit, je le sens et ne m'en afflige point. Pourquoi chercherais-je à guérir d'une si douce folie, puisqu'elle contribue à me rendre heureux Gens du monde et de la cour, n'allez pas vous croire plus sage que moi. Nous ne différons que par nos chimères. Voici donc la mienne en cette occasion. Je pense que. Si nous sommes tous deux tels que j'aime à le croire, nous pouvons former un spectacle rare et peut-être unique dans un commerce d'estime et d'amitié, vous m'avez dicté ce mot, entre deux hommes d'état si divers qu'ils ne semblaient pas faits pour avoir la moindre relation entre eux. Mais pour cela, monsieur, il faut rester tel que vous êtes et me laisser tel que je suis. Ne veuillez point être mon patron. Je vous promets, moi, de ne point être votre panégériste. Je vous promets de plus que nous aurons fait tous les deux une très belle chose, et que notre société, si j'ose employer ce mot, sera pour l'un et pour l'autre un sujet d'éloge préférable à tous ceux que l'adulation prodigue. Au contraire, si vous voulez me protéger, me faire des dons, obtenir pour moi des grâces, me tirer de mon état et que j'acquiesce à vos bienfaits, vous n'aurez recherché qu'un faiseur de phrases, et vous ne serez plus qu'un grand à mes yeux j'espère que ce n'est pas à cette opinion réciproque qu'aboutiront les bontés dont vous m'honorez mais monsieur il faut vous avouer tout mon embarras je n'imagine point la possibilité de ne voir que vous et madame la maréchale au milieu de la foule inséparable de votre rang et dont vous êtes sans cesse environné c'est pourtant une condition dont j'aurais peine à me départir je ne veux ni complaire aux curieux, ni voir, pas même un moment, d'autres hommes que ceux qui me conviennent, et si j'avais cru faire pour vous une exception, je ne l'aurais jamais faite. Mon humeur ne souffre aucune gêne. Mes incommodités, qui ne la seraient supportées, mes maximes sur lesquelles je ne veux point me contraindre et qui sûrement offenseraient tout autre que vous, la paix surtout et le repos de ma vie, tout m'impose la douce loi de finir comme j'ai commencé. Monsieur le maréchal, je souhaite de vous voir, de cultiver votre estime, d'apprendre de vous à la mériter, mais je ne puis vous sacrifier ma retraite. Faites que je puisse vous voir seul et trouvez bon que je ne vous vois que de cette manière. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir ainsi capitulé avec vous avant d'accepter l'honneur de vos offres. Et c'est encore un hommage que je crois devoir à votre générosité de vous dire mes fantaisies qu'après m'être mis en votre pouvoir. Car en sentant quel devoir j'allais contracter, j'en ai pris l'engagement sans crainte. Je n'ignore pas que mon séjour ici, qui n'est rien pour vous, est pour moi d'une extrême conséquence. Je sais que quand je n'y aurais couché qu'une nuit, le public, la postérité peut-être, me demanderait compte de cette seule nuit. Sans doute ils me le demanderont du reste de ma vie. Je ne suis pas en peine de la réponse. Monsieur, ce n'est pas à moi de la faire. En vous nommant, il faut que je sois justifié ou jamais je ne saurais l'être. Je ne crois pas avoir besoin d'excuses pour le temps que je prends avec vous. Il me semble que vous devez m'entendre. Monsieur le maréchal, je pourrais, il est vrai, vous parler en termes plus respectueux, mais non pas plus honorables. À Madame la Maréchale de Luxembourg, à Montmorency, le 29 octobre 1759. Où êtes-vous à présent, Madame la Maréchale? À Paris? À lisle À Versailles? Car je sais que vous avez fait ce mois-ci tous ces voyages. Vous me trouverez curieux, mais puisque cette curiosité m'intéresse, elle est dans l'ordre. À Versailles, vous parlez de moi avec Monsieur le Maréchal. À lisle vous en parlez avec le Chevalier de Lorenzi. Mais à Paris, avec qui en parlez-vous? Je m'imagine que c'est à Paris qu'on va oublier les gens qu'on aime, et comme je le hais, je l'accuse de tous les maux que je crains. De grâce, madame la maréchale, songez quelquefois qu'il existe à Montmorency un pauvre ermite à qui vous avez rendu votre souvenir nécessaire et qui ne va point à Paris. Mais en vérité, je ne sais de quoi je m'inquiète après les bontés dont vous m'avez honoré dois-je craindre d'être oublié dans vos courses et dans quelque lieu que vous puissiez être n'en sais-je pas un duquel vous ne sortez point vos copines ne sont pas encore commencées mais elles vont l'être en toute chose il faut suivre l'ordre et la justice quelqu'un vous le savez est en date avant vous ce quelqu'un me presse et il faut bien tenir ma parole puisque vous ne voulez pas que je dise les raisons que j'aurai de la retirer je vais finir la cinquième partie, et avant de commencer la sixième, je ferai en sorte de vous envoyer la première. Mais, madame la maréchale, quoique vous soyez sûrement une fort bonne pratique, je me fais quelque peine de prendre votre argent. Régulièrement, ce serait à moi de payer le plaisir que j'aurais de travailler pour vous. Grondez un peu, monsieur le maréchal, je vous supplie de ce que dans l'embarras où il est, il prend la peine de m'écrire lui-même. J'ai désiré d'avoir souvent de ses nouvelles et des vôtres, mais non pas que ce fût lui qui m'en donna. Ne sait-il pas que je n'ai plus besoin qu'il m'écrive? S'il m'écrit encore une fois de tout le quartier, je croirais lui avoir déplu. Pour vous, madame, il n'en est pas tout à fait de même. Je crois que j'ai encore besoin de quelques mots d'amitié. Et puis, quand je serai sûr également de tous deux, vous pourrez ne jamais m'écrire ni l'un ni l'autre, que je n'en serai pas moins content, pourvu que madame Gertrude ou monsieur Dubetier m'apprennent de temps en temps que vous vous portez bien. À madame la marquise de Verdelin, à Paris, mercredi 12 mars 1760. Vous avez presque honte de votre santé, madame. Que dirais-je de la mienne, moi qui dois des excuses au public d'être encore en vie Depuis que j'ai le cœur dur, que je n'aime plus personne, et que j'appelle tout le monde mon ami, j'engraisse comme un cochon. Je ne sache point de meilleure recette pour se porter bien que l'insensibilité. Et si c'est la vôtre, je vous en félicite. Et on jouit fort paisiblement d'une santé gagnée à ce prix on dit que nous ne tarderons pas à vous voir en ce pays ici j'attends ce moment avec un empressement que je tâche de rendre médiocre afin qu'il ne nuise pas à mon embonpoint on m'écrit qu'on a renouvelé depuis peu le miracle de la broche, et l'on ajoute que la sainte, étant cuite, mangera le poulet qu'on avait fait cuire avec elle. J'ai assez de leurs miracles qu'on ne m'en parle plus. S'ils commencent par faire rire, ils finissent par faire gémir. Gloire de la philosophie. Le siècle des philosophes est le siècle des fous, des lâches et des fripons. On dit que tous ces gens là combattent mes maximes. On se trompe. Ils travaillent sans cesse à l'éprouver. Bonjour, madame. À Monsieur Lénieps, à Montmorency, le 15 mai 1760. Quoique je sois si pressé, si accablé, mon bon ami. Qu'on ne me laisse pas un seul moment de libre, il faut que j'en prenne un pour vous tranquilliser sur la difficulté qui vous inquiète dans l'introduction des sondes. Car je crois que pour la comparaison de votre état au mien, vous avez de quoi vous moins alarmer quand vous saurez, et M. Cabanis a pu dans le temps vous le dire, qu'il y a dix ans et plus que ni sondes ni bougies, quelque minces qu'elles fussent, n'ont pu entrer dans le canal de l'urètre de votre ami et qu'il y en a plus de quinze qui l'urinent avec difficulté, sans qu'il puisse passer un seul grain de gravier par les urines, tellement que, se filtrant à travers les embarras avec la plus grande peine, elle laisse dans la vessie tous les dépôts qui s'y accumulent incessamment que, malgré cela, convaincu que tous les secours humains me sont aussi inutiles que douloureux, j'y ai renoncé depuis huit ans, et ne m'en trouve pas plus mal. « Au contraire, ôtez les attaques douloureuses auxquelles je ne fais rien que prendre patience. Au surplus, je vais, viens, agis, mange et bois et jouis, même à présent d'un embonpoint dont j'ai presque honte. Mon bon ami, si vous n'aviez rien fait du tout, votre attaque se serait passée. Vous seriez aussi bien guéri que vous l'êtes. Et l'embarras que vous sentez dans l'urètre ne sera rien, pourvu qu'on ne l'augmente point en vous tracassant avec des bougies et des sondes. Il faut prendre le parti de supporter le mal quand il Bien et de se porter bien sitôt qu'on ne souffre plus tel est mon avis et telle est ma pratique quand vous pourrez me venir voir marquez-moi le jour d'avance afin que je sois libre et tout à vous après tous les maux que vous venez de souffrir il me sera bien doux de vous voir bien portant dans ma solitude monsieur roguin m'avait promis d'y passer quelques jours ce printemps je n'ai rien dit tant que sa compagnie et ses consolations vous étaient utiles mais maintenant je vois bien qu'il m'oublie s'il veut me prouver le contraire, engagez-le à vous accompagner Montmorency, et qu'il fasse au moins pour vous ce qu'il ne veut pas faire pour moi. Au reste, il ne faut pas venir pour s'en retourner le même jour, et ne soyez pas en peine du gîte, on aura soin de pourvoir à tout. Adieu, mon bon ami, portez à votre digne fille les respects de l'homme du monde qui l'honore le plus. À Monsieur de Voltaire. À Montmorency, le 17 juin 1760. Je ne pensais pas, monsieur, me trouver jamais en correspondance avec vous. Mais apprenant que la lettre que je vous écrivis en 1756 a été imprimée à Berlin, je dois vous rendre compte de ma conduite à cet égard, et je remplirai ce devoir avec vérité et simplicité. Cette lettre, vous ayant été réellement adressée, n'était point destinée à l'impression. Je la communiquais sous condition à trois personnes, à qui les droits de l'amitié ne me permettaient pas de rien refuser de semblable, et à qui les mêmes droits permettaient encore moins d'abuser de leurs dépôts en violant leurs promesses. Ces trois personnes sont Madame de Chenonceau, belle-fille de Madame Dupin, Madame la Comtesse d'Oudetot, et un Allemand nommé Monsieur Grimm. Madame de Chenonceau souhaitait que cette lettre fût imprimée et me demanda mon consentement pour cela. Je lui dis qu'il dépendait du vôtre. Il vous fut demandé, vous le refusâtes et il n'en fut plus question. Cependant, Monsieur l'abbé Trublet, avec qui je n'ai nulle espèce de liaison, vient de m'écrire par une attention pleine d'honnêteté qu'ayant reçu les feuilles d'un journal de Monsieur Formet, il y avait lu cette même lettre. Avec un avis dans lequel l'éditeur dit sous la date du 23 octobre 1759 qu'il l'a trouvé il y a quelques semaines chez les libraires de Berlin et que comme c'est une de ces feuilles volantes qui disparaissent bientôt sans retour, il a cru lui devoir donner place dans son journal. Voilà, monsieur, tout ce que j'en sais. Il est très sûr que jusqu'ici l'on n'avait pas même ouï parler à Paris de cette lettre. Il est très sûr que l'exemplaire, soit manuscrit, soit imprimé, tombé dans les mains de M. Formet, n'a pu lui venir que de vous, ce qui n'est pas vraisemblable, ou d'une des trois personnes que je viens de nommer. Enfin, il est très sûr que les deux dames sont incapables d'une pareille infidélité. Je n'en puis savoir davantage de ma retraite. Vous avez des correspondances au moyen desquelles il vous serait aisé, si la chose en valait la peine, de remonter à la source et de vérifier le fait. Dans la même lettre, monsieur l'abbé Trublet me marque qu'il tient la feuille en réserve et ne la prêtera point sans mon consentement, qu'assurément je ne donnerai pas. Mais cet exemplaire peut n'être pas le seul à Paris. Je souhaite, monsieur, que cette lettre n'y soit pas imprimée, et je ferai de mon mieux pour cela. Mais si je ne pouvais éviter qu'elle le fût et qu'instruit à temps je puisse avoir la préférence, alors je n'hésiterai pas à la faire imprimer moi-même. Cela me paraît juste et naturel. Quant à votre réponse à la même lettre, elle n'a été communiquée à personne et vous pouvez compter qu'elle ne sera point imprimée sans votre aveu, qu'assurément je n'aurai point la discrétion de vous demander, sachant bien que ce qu'un homme écrit à un autre, il ne l'écrit pas au public. Mais si vous en vouliez faire une pour être publiée et me l'adresser, je vous promets de la joindre fidèlement à ma lettre et de n'y pas répliquer un seul mot. Je ne vous aime point, monsieur. Vous m'avez fait les mots qui pouvaient m'être les plus sensibles à moi, à votre disciple et votre enthousiaste. Vous avez perdu Genève pour le prix de l'asile que vous y avez reçu. Vous avez aliéné de moi mes concitoyens pour le prix des applaudissements que je vous ai prodigués parmi eux. C'est vous qui me rendez le séjour de mon pays insupportable. C'est vous qui me ferez mourir en terre étrangère, privé de toutes les consolations des mourants et jeté pour tout honneur dans une voirie, tandis que tous les honneurs qu'un homme peut attendre vous accompagneront dans mon pays. Je vous hais enfin, puisque vous l'avez voulu, mais je vous hais en homme encore plus digne de vous aimer si vous l'aviez voulu. De tous les sentiments dont mon cœur était pénétré pour vous, il n'y reste que l'admiration qu'on ne peut refuser à votre beau génie et l'amour de vos écrits. Si je ne puis honorer en vous que vos talents, ce n'est pas ma faute. Je ne manquerai jamais au respect qu'il aurait dû, ni au procédé que ce respect exige. À Madame de Luxembourg, ce dimanche 26 octobre 1760. Permettez, Madame la Maréchale, que je vous envoie le bulletin de ma journée d'hier. J'appris le matin que vous deviez passer à Saint-Brice entre midi et une heure. Je dînais à onze heures et demie, et de peur d'arriver trop tard, voulant gagner le temps du relais, j'allais couper le grand chemin au barrage de Pierrefitte. De là, je remontais au petit pas jusqu'à la vue de Saint-Brice. Là, les premières gouttes de pluie m'ayant surpris, je fus me réfugier chez le curé de Groslet, d'où voyant que la pluie ne faisait qu'augmenter, je pris enfin le parti de me remettre en route, et j'arrivais chez moi, mouillé jusqu'aux os, crotté jusqu'au dos et qui ne vous ayant point vu. Je voudrais bien, Madame la Maréchale, que tous ces mots excitassent votre pitié et me valussent un petit emplâtre de papier blanc. à madame la marquise de Verdelin, à Montmorency le 5 novembre 1760. Vous me dites, madame, que vous ne vous êtes pas bien expliqué pour me faire entendre que je m'explique mal. Vous me parlez de votre prétendue bêtise pour me faire sentir la mienne. Vous vous vantez de n'être qu'une bonne femme, comme si vous aviez peur d'être prise au mot, et vous me faites des excuses pour m'apprendre que je vous en dois. Oui, madame, je le sais bien, c'est moi qui suis une bête, un bonhomme, et puis encore s'il est possible, c'est moi qui choisis mal mes termes, au gré d'une belle dame française, qui fait tant d'attention aux paroles et qui parle aussi bien que vous, mais considérez que je les prends dans le sens commun de la langue, sans être au fait ou en souci des honnêtes acceptions qu'on leur donne dans les vertueuses sociétés de Paris. Si quelquefois mes expressions ont un tour équivoque, je tâche de vivre de manière que ma conduite en détermine le sens. Je me suis rendu peu difficile, madame, sur vos premiers présents, ou dons, ou cadeaux, ou comme il vous plaira de les appeler, car je ne sais pas trouver le mot propre. J'y recevais avec reconnaissance les témoignages de votre bon cœur, et, comme vous disiez vous-même, les soins de votre amitié. Quand ils ont commencé à devenir plus fréquents et plus incommodes, je vous l'ai dit. Alors, mademoiselle Levasseur vous a servi de prétexte, et enfin, monsieur Coindet, comme si ce qu'on m'envoie à manger chez moi pouvait paraître ailleurs que sur ma table. Je ne sais, madame, si vous vous plaisez à me contraindre, ou si vous me soupçonnez de ne rien faire que jouer, mais je sais bien que ces jeux-là me lassent et que je n'en veux plus souffrir. Au reste, je trouve assez injuste que, donnant tant d'importance à ce que je dis et si peu à ce que je fais, vous me traitiez en homme par mes paroles et en enfant par mes actions. Je n'ai point oublié et je n'oublierai jamais les attentions et les bontés dont vous m'avez honoré, et ce souvenir ne peut qu'augmenter le regret que j'ai de n'être pas d'un meilleur commerce et plus digne d'être admis dans votre société. J'avais besoin sans doute d'être averti que je ne suis près de vous qu'une simple connaissance. Si vous me l'eussiez dit plus tôt, madame, je vous aurais épargné l'ennui de mes visites, car pour moi je n'ai point de temps à donner à mes connaissances, je n'en ai que pour mes amis. Recevez madame et les assurances de mon plus profond respect. À Monsieur Coindèche et Messieurs Tellusson et Necker, rue Michel-le-Comte à Paris, ce lundi matin 19 janvier 1761. Les trois estampes en question ne seraient regarder les pages recto. Cela est de toute impossibilité pour celle du fiacre, attendu qu'elle regarderait une autre lettre que celle à laquelle elle appartient si elle était après. Et qu'elle serait absurde si elle était avant, comme anticipant une situation qui n'est même pas supposée à la fin de la lettre. Les deux autres ne seraient guère moins ridicules. Le meilleur parti sera d'attacher vos estampes deux à deux, tout comme si elles regardaient le même côté. Si la marge est un peu large, il sera aisé d'attacher au livre ces trois estampes par le côté droit. Et si la marge est trop étroite, on pourra toujours les mettre sur des onglets comme des cartons. Ce sera l'affaire des relieurs. Plus je regarde la dernière estampe, plus je la trouve ignoble. Et c'est le plus grand défaut qu'elle puisse avoir. Il faudrait dans les figures de Claire et de Volmar une certaine noblesse de maintien qui les distingua du peuple qui est dans la chambre. Et au contraire, Volmar semble un vieux apothicaire, éclaire une grosse joufflue de servante qui tient un torchon. Il faut absolument remédier à cela. Et si cela ne se peut, j'aimerais mieux supprimer l'estampe. Voici là-dessus quelques idées. Le voile doit être beaucoup plus ample et plus long. On doit juger de sa finesse par la forme des plis et de sa richesse par la broderie qui paraît autour. Il est dit que c'est un voile d'or brodé de perles à portée des Indes. Vous m'avouerez que celui de l'estampe n'est qu'une véritable panosse. Il me semble qu'avec un peu d'adresse, il ne serait pas impossible de cacher en tout ou en partie le visage de la morte par quelques replis flottants du même voile. Et sûrement cette finesse de l'art n'échapperait pas aux spectateurs. Claire n'a pas la taille assez fine. Son visage est trop plein. On n'est pas ainsi dans une profonde affliction, surtout après beaucoup de fatigue et d'insomnie. Elle devrait être dans un déshabillé très négligé à la vérité, mais pourtant qui sentit sa dame, et l'on ne voit rien de tout cela. Il faut ajouter au moins quelques manières de garniture à sa robe ou à sa jupe, et lui donner des manchettes plus longues et plus plissées qu'à la femme qui est à côté. Je ne puis m'empêcher d'ajouter que si les plis de la robe tombaient moins perpendiculairement et qu'ils descendissent un peu plus de biais du devant en arrière, cela seul ferait supposer une robe plus traînante et donnerait à l'habillement beaucoup plus de noblesse et de grâce. L'habit de monsieur de Volmar est si large, quoique boutonné, qu'il paraît un habit pris à la frapperie. Il faut déboutonner l'habit en sorte que les basques soient plus en arrière ou bien le rendre plus juste au corps. La morte elle-même ressemble à une ravaudeuse. La richesse de l'ameublement tranche ridiculement avec la bassesse des personnages. On ne les croira jamais faits pour habiter cette chambre-là. Cette estampe devrait avoir je ne sais quel air de merveilleux, de féerie. Elle a précisément l'opposé. Ah, adieu, cher Coindet. J'espère que vous me donnerez des nouvelles de Madame la Maréchale. Je vous embrasse. À Madame de Luxembourg. À Montmorency, le 12 juin 1761. Que de choses j'aurais à vous dire avant que de vous quitter. Mais le temps me presse. Il faut abréger ma confession et verser dans votre cœur bienfaisant mon dernier secret. Vous saurez donc que depuis seize ans, j'ai vécu dans la plus grande intimité avec cette pauvre fille qui demeure avec moi, excepté depuis ma retraite à Montmorency, que mon état m'a forcé de vivre avec elle comme avec ma sœur. Mais ma tendresse pour elle n'a point diminué, et sans vous, l'idée de la laisser sans ressources empoisonnerait mes derniers instants. De ces liaisons sont provenus cinq enfants, qui ont tous été mis aux enfants trouvés, et avec si peu de précautions pour les reconnaître un jour, que je n'ai même pas gardé la date de leur naissance. Depuis plusieurs années, le remords de cette négligence trouble mon repos, et je meurs sans pouvoir la réparer, au grand regret de la mère et au mien. Je fis mettre seulement dans les langes de l'aîné une marque dont j'ai gardé le double. Il doit être né, ce me semble, dans l'hiver de 1746 à 47, ou à peu près. Voilà tout ce que je me rappelle. S'il y avait le moyen de retrouver cet enfant, ce serait faire le bonheur de sa tendre mère mais j'en désespère, et je n'emporte point avec moi cette consolation. Les idées dont ma faute a rempli mon esprit ont contribué en grande partie à me faire méditer le traité de l'éducation, et vous y trouverez dans le livre premier un passage qui peut vous indiquer cette disposition. Je n'ai point épousé la mère et je n'y étais point obligé, puisqu'avant de me lire avec elle, je lui ai déclaré que je ne l'épouserais jamais, et même un mariage public nous eût été impossible à cause de la différence de religion. Mais du reste, je l'ai toujours aimée et honorée comme ma femme, à cause de son bon cœur, de sa sincère affection, de son désintéressement sans exemple et de sa fidélité sans tâche, sur laquelle elle ne m'a pas même occasionné le moindre soupçon. Voilà, madame la maréchale, la trop juste raison de ma sollicitude sur le sort de cette pauvre fille après qu'elle m'aura perdue. Tellement que si j'avais moins de confiance en votre amitié pour moi et en celle de monsieur le maréchal, je partirais pénétré de douleur de l'abandon où je la laisse. Mais je vous la confie et je meurs en paix à cet égard. Il me reste à vous dire ce que je pense qui conviendrait le mieux à sa situation et à son caractère et qui donnerait le moins de prise à ses défauts. Ma première idée était de vous prier de lui donner asile dans votre maison, ou auprès de l'enfant qui en est l'espoir, jusqu'à ce qu'il sortît des mains des femmes mais infailliblement cela ne réussirait point. Il y aurait trop d'intermédiaires entre vous et elle, et elle a dans votre maison des malveillants qu'elle ne s'est assurément point attirée par sa faute et qui trouverait infailliblement l'art de la disgracier tôt ou tard auprès de vous ou de monsieur le maréchal. Elle n'a pas assez de souplesse et de prudence pour se maintenir avec tant d'esprits différents et se prêter aux petits manèges avec lesquels on gagne la confiance des maîtres, quelque éclairé qu'ils soient. Encore une fois, cela ne réussirait point, ainsi je vous prie de n'y pas songer. Je ne voudrais pas non plus qu'elle demeurât à Paris de quelque manière que ce fût. Bien sûr que, craintive et facile à subjuguer, elle y deviendrait la proie et la victime de sa nombreuse famille, gens d'une avidité et d'une méchanceté sans bornes auxquelles j'ai eu moi-même bien de la peine à l'arracher et qui sont cause en grande partie de ma retraite en campagne. Si jamais elle demeure à Paris, elle est perdue. Car, alors, fût-elle cachée, comme elle est d'un bon naturel, elle ne pourra jamais s'abstenir de les voir, et en peu de temps, ils lui suceront le sang jusqu'à la dernière goutte, et puis la feront mourir de mauvais traitements. Je n'ai pas de moins forte raison pour souhaiter qu'elle n'aille point demeurer avec sa mère, livrée à mes plus cruels ennemis, nourrie par eux à mauvaise intention, et qui ne cherchent que l'occasion de punir cette pauvre fille de n'avoir point voulu se prêter à leur complot contre moi. Elle est la seule qui n'ait rien eu de sa mère, et la seule qui l'ait nourrie et soignée dans sa misère. Et si j'ai donné durant douze ans asile à cette femme, vous comprenez bien que c'est pour la fille que je l'ai fait. J'ai mille raisons trop longues à détailler pour désirer qu'elle ne retourne point avec elle. Ainsi, je vous prie d'interposer, même s'il le faut, votre autorité pour l'en empêcher. Je ne vois que deux parties qui lui conviennent l'un, de continuer d'occuper mon logement et de vivre en paix à Montmorency, ce qu'elle peut faire à peu de frais avec votre assistance et protection, tant du produit de mes écrits que de celui de son travail car elle coûte très bien, et il ne lui manque que de l'occupation que vous voudrez bien lui donner ou lui procurer, souhaitant seulement qu'elle ne soit point à la discrétion des femmes de chambre, car leur tyrannie et leur monopole me sont connus. L'autre partie est d'être placée dans quelque communauté de province où l'on vit à bon marché et où elle pourrait très bien gagner sa vie par son travail. J'aimerais moins ce parti que l'autre, parce qu'elle serait ainsi trop loin de vous et pour d'autres raisons encore. Vous choisirez pour le mieux, madame la maréchale. Mais quelque choix que vous fassiez, je vous supplie de faire en sorte qu'elle ait toujours sa liberté et qu'elle soit la maîtresse de changer de demeure si tôt qu'elle ne se trouvera pas bien. Je vous supplie enfin de ne pas dédaigner de prendre soin de ces petites affaires, en sorte que, quoi qu'il arrive, elle ait du pain jusqu'à la fin de ses jours. J'ai prié monsieur le maréchal de vous consulter sur le choix de la personne qu'il chargerait de veiller aux intérêts de la pauvre fille après mon décès. Vous n'ignorez pas l'injuste partialité que marque contre elle celui qui, naturellement, serait choisi pour cela. Quelque estime que j'ai conçue pour sa probité, je ne voudrais pas qu'elle restât à la merci d'un homme que je dois croire honnête, mais que je vois livré par un aveuglement inconcevable aux intérêts et aux passions d'un fripon. Vous voyez, madame le maréchal, avec quelle simplicité, avec quelle confiance j'épanche mon cœur devant vous. Tout le reste de l'univers n'est déjà plus rien à mes yeux. Ce cœur qui vous aima sincèrement ne vit déjà plus que pour vous, pour monsieur le maréchal et pour la pauvre fille. Adieu, amis tendres et chéris. Aimez un peu ma mémoire. Pour moi, j'espère vous aimer encore dans l'autre vie, mais quoi qu'il en soit de cet obscur et redoutable mystère, en quel cœur que la mort me surprenne, je suis sûr qu'elle me trouvera pensant à vous. Pour M. Duparc, Don Deschamps, à Montmorency, le 25 juin 1761 vous me pardonnerez, monsieur, le délai de ma réponse quand vous saurez que j'ai été très mal et que je continue d'être en proie à des douleurs sans relâche qui ne me laissent guère la liberté d'écrire. La vérité que j'aime n'est pas tant métaphysique que morale. J'aime la vérité parce que je hais le mensonge. Je ne puis être inconséquent là-dessus que quand je serai de mauvaise foi. J'aimerais bien aussi la vérité métaphysique si je croyais qu'elle fût à notre portée mais je n'ai jamais vu qu'elle fût dans les livres, et, désespérant de l'y trouver, je dédaigne leur instruction, persuadé que la vérité qui nous est utile est plus près de nous, et qu'il ne faut pas pour l'acquérir un si grand appareil de science. Votre ouvrage, monsieur, peut donner cette démonstration promise et manquée par tous les philosophes mais je ne puis changer de maxime sur des raisons que je ne connais pas. Cependant votre confiance m'en impose. Vous promettez tant et si hautement. Je trouve d'ailleurs tant de justesse et de raison dans votre manière d'écrire que je serais surpris qu'il n'y en eût pas dans votre philosophie et je devrais peu l'être avec ma courte vue que vous vissiez où je n'avais pas cru qu'on pût voir. Or ce doute me donne de l'inquiétude, parce que la vérité que je connais ou ce que je prends pour elle est très aimable, qu'il en résulte pour moi un état très doux, et que je ne conçois pas comment j'en pourrais changer sans y perdre. Si mes sentiments étaient démontrés, je m'inquiéterais peu des vôtres mais à parler sincèrement, je suis bien plus persuadé que convaincu. Je crois, mais je ne sais pas. Je ne sais pas même si la science qui me manque me sera bonne ou mauvaise, et si peut-être après l'avoir acquise, il ne faudra pas dire elle a cherché la lumière dans les hauteurs du ciel, et elle a gémis de l'avoir trouvée. Voilà, monsieur, la solution, ou du moins l'éclaircissement des inconséquences que vous me reprochez. Cependant, il me paraît dur qu'il faille que je me justifie pour vous avoir dit mon sentiment quand vous me l'avez demandé. Je n'ai pris la liberté de vous juger que pour vous complaire. Je puis m'être trompé sans doute, mais l'erreur en ceci n'est pas un tort. Vous me demandez pourtant encore un conseil sur un sujet très grave, et je vais peut-être encore vous répondre tout de travers, mais heureusement, ce conseil est de ce qu'un auteur ne demande guère que quand il a déjà pris son parti. Je remarquerai d'abord que la supposition que votre ouvrage renferme la découverte de la vérité ne vous est pas particulière elle est commune à tous les philosophes sur ce motif ils publient leurs livres et la vérité reste à découvrir. J'ajouterai qu'il ne suffit pas de considérer le bien qu'un livre contient en lui-même, mais qu'on doit aussi peser le mal auquel il peut donner lieu. Il faut songer qu'il trouvera moins de lecteurs bien disposés que de mauvais cœurs et de têtes mal faites. Il faut, avant de le publier, comparer le bien et le mal qu'il peut faire, et les usages avec les abus. C'est par celui de ces deux effets qui doit l'emporter sur l'autre qu'il est bon ou mauvais à publier. Si je vous connaissais, monsieur, si je savais quel est votre sort, votre état, votre âge, j'aurais peut-être aussi quelque chose à vous dire par rapport à vous. On peut courir des hasards tandis qu'on est jeune, mais il n'est pas censé d'exposer le repos de sa vie après avoir atteint la maturité. J'ai souvent ouï dire à Monsieur de Fontenelle que jamais livre n'avait donné tant de plaisir que de chagrin à son auteur. C'était le Fontenelle qui disait cela. Jusqu'à quarante ans, je fus sage. À quarante ans, je pris la plume, et je la pose avant cinquante, maudissant tous les jours de ma vie celui où mon sot orgueil me la fit prendre, et où je vis mon bonheur, mon repos, ma santé s'en aller en fumée, sans espoir de les recouvrer jamais. Voilà l'homme à qui vous demandez conseil sur la publication d'un livre. Je vous salue, monsieur, de tout mon cœur. À Jacqueline Danel, à Montmorency le 22 juillet 1761 Votre lettre, ma chère Jacqueline, est venue réjouir mon cœur dans un moment où je n'étais guère en état d'y répondre. Je saisis un temps de relâche pour vous remercier de votre souvenir et de votre amitié qui me sera toujours chère. Pour moi, je n'ai point cessé de penser à vous et de vous aimer. Souvent je me suis dit dans mes souffrances que si ma bonne Jacqueline n'avait pas tant pris de peine à me conserver étant petit, je n'aurais pas souffert tant de maux étant grand. Soyez persuadés que je ne cesserai jamais de prendre le plus tendre intérêt à votre santé et à votre bonheur, et que ce sera toujours un vrai plaisir pour moi de recevoir de vos nouvelles. Adieu, ma chère et bonne Jacqueline, je ne vous parle pas de ma santé pour ne point vous affliger, que le bon Dieu conserve la vôtre et vous comble de tous les biens que vous désirez, votre pauvre Jean-Jacques qui vous embrasse de tout son cœur. « À Monsieur Duparc, dans Deschamps, à Montmorency le 12 septembre 1761. Ce que vous m'apprenez, monsieur, dans votre dernière lettre me fait trembler sur la publication de votre ouvrage. Si j'avais dix raisons de vous en détourner, j'en ai maintenant dix mille. Je comprends combien vous devez en être tenté, mais vous qui avez une tête si judicieuse, ne sauriez disconvenir avec vous-même qu'une telle démarche ne le fût très peu. Je suis presque assuré que vous feriez le malheur de votre vie. Je ne puis trop vous conjurer d'y bien réfléchir. S'il ne s'agissait que de vous procurer les facilités que vous n'avez pas, c'est un petit service que je pourrais rendre à vous et peut-être au public, mais que vous ne devez jamais attendre de moi que vous ne m'ayez prouvé que vous ne risquez rien du tout. Vos épîtres m'ont fait plaisir, mais c'est trop d'une. Vous ne sauriez dédier à la fois à votre livre au public et à votre meilleur ami. Ce serait se moquer de l'un des deux, ou plutôt de tous les deux. Le mot des dieux dans cet envers est bien effarouchant. Je ne hais pas cette franchise qui va jusqu'à l'audace. Je l'ai quelquefois impunément, parce que je ne tiens à rien et que je mets hardiment tout le monde au pied. Mais vous ne pouvez pas dire la même chose. Cette idée de la protection des hommes me semble un peu romanesque. Un homme que protégerait le genre humain serait fort mal protégé, parce que le genre humain n'est rien, il n'y a que les puissances qui soient quelque chose. Or, vous n'ignorez pas sans doute que sur rien au monde les puissances ne sont ni ne peuvent être de la vie du public. J'avais déjà remarqué sur quelques endroits de votre préface, et je remarque encore dans votre épître aux hommes, que vos périodes sont quelquefois un peu enchevêtrées. Prenez garde à cela, surtout dans un livre de métaphysique. Je ne connais point de style plus clair que le vôtre, mais il le deviendra plus encore si vous pouvez couper un peu plus vos périodes et retrancher quelques pronoms. Je vous aimais sur vos lettres, je vous aime encore plus sur votre portrait. Je ne me défie pas même beaucoup de la partialité de l'auteur, précisément à cause qu'il dit de lui sans détour le bien qu'il en pense. Je me souviens que vous m'avez loué d'être modeste, mais je vous avoue que j'aimerais toujours beaucoup les gens qui auront le courage de ne l'être pas. Je suis persuadé que vous ressemblez à votre portrait et j'en suis fort aise. Au reste, je suis persuadé qu'on est toujours très bien peint lorsque l'on sait peint soi-même, quand même le portrait ne ressemblerait point. Vous êtes bien bon de me tenser sur mes inexactitudes en fait de raisonnement. En êtes-vous à vous apercevoir que je vois très bien certains objets, mais que je n'en sais point comparer que je suis assez fertile en propositions sans jamais voir de conséquences, qu'ordre et méthode qui sont vos dieux sont mes furies, que jamais rien ne s'offre à moi qu'isoler, et qu'au lieu de lier mes idées dans mes écrits, j'use d'une charlatanerie de transition qui vous en impose tous les premiers, à tous vous autres grands philosophes. C'est à cause de cela que je me suis mis à vous mépriser, voyons bien que je ne pouvais pas vous atteindre. C'est, je pense, répondre assez à l'article qui regarde l'impression de nos lettres, que de vous écrire celle ci. Vous devez voir qu'un homme qui écrit de pareilles folies ne les écrit pas pour être imprimé, pas même pour être relu, encore moins copié. Je veux être libre, incorrect, sans conséquence dans mes lettres comme dans ma conversation. Je ne voudrais plus d'un commerce où il faudrait sans cesse être auteur. Cependant, si vous avez assez de temps et de soins à perdre pour vouloir garder et copier mes lettres, je ne vous gêne point là-dessus, pourvu qu'il ne soit jamais question d'impression. Quant aux vôtres, j'ai toujours été fidèle à les brûler et ne les ai point copiés. Et vous devez croire que je n'en userai pas plus négligemment à l'avenir aussi longtemps que vous continuerez à l'exiger, puisque j'en sens mieux la conséquence. Bonjour monsieur, je vous embrasse. Un monsieur Moultou à Montmorency le 23 décembre 1761. C'en est en effet, cher Moultou. Nous ne nous reverrons plus que dans le séjour des justes. Mon sort est décidé par les suites de l'accident dont je vous ai parlé ci-devant, et quand il en sera temps, je pourrai sans scrupule prendre chez Milord Edouard les conseils de la vertu même. Ce qui m'humilie et m'afflige est une fin si peu digne, j'ose dire, de ma vie et du moins de mes sentiments. Il y a six semaines que je ne fais que des iniquités, et n'imagine que des calomnies contre deux honnêtes libraires, dont l'un n'a de tort que quelques retards involontaires, et l'autre un zèle plein de générosité et de désintéressement, que j'ai payé pour toute reconnaissance d'une accusation de fourberie. Je ne sais quel aveuglement, quelle sombre humeur, inspirée dans la solitude par un mal affreux, m'a fait inventer pour en noircir ma vie et l'honneur d'autrui, ce tissu d'horreur, dont le soupçon changé dans mon esprit prévenu, presque en certitude, n'a pas mieux été déguisé à d'autres qu'à vous. Je sens pourtant que la source de cette folie ne fut jamais dans mon cœur. Le délire de la douleur m'a fait perdre la raison avant la vie. En faisant des actions de méchants, je n'étais qu'un insensé. Toutefois, dans l'état de dérangement où est ma tête, ne me fiant plus à rien de ce que je vois et de ce que je crois, j'ai pris le parti d'achever la copie du morceau dont je vous ai parlé ci devant, et même de vous l'envoyer, très persuadé qu'il ne sera jamais nécessaire d'en faire usage, mais plus sûr encore que je ne risque rien de le confier à votre probité. C'est avec la plus grande répugnance que je vous extorque les frais immenses que ce paquet vous coûtera par la poste. Mais le temps presse, et tout bien pesé, j'ai pensé que de tous les risques, celui que je pouvais regarder comme le moindre était celui d'un peu d'argent. Certainement, j'aurais fait mieux si je l'avais pu sans danger. Mais au reste, en supposant, comme je l'espère, qu'il ne sera jamais nécessaire d'ébruiter cette affaire, je vous en demande le secret, et je mets mes dernières fautes à couvert sous l'aile de votre charité. Le paquet sera mis demain, 24 décembre, à la poste, sans lettre, et même il y a quelque apparence que c'est ici la dernière que je vous écrirai. Adieu, cher Moultou. Vous concevrez aisément que la profession de foi du vicaire savoyard est la mienne. Je désire trop qu'il y ait un Dieu pour ne pas le croire, et je meurs avec la ferme confiance que je trouverai dans son sein le bonheur et la paix dont je n'ai pu jouir ici bas. J'ai toujours aimé tendrement ma patrie et mes concitoyens. J'ose attendre de leur part quelques témoignages de bienveillance pour ma mémoire. Je laisse une gouvernante presque sans récompense après dix-sept ans de service et de soins très pénibles auprès d'un homme presque toujours souffrant. Il me serait affreux de penser qu'après m'avoir consacré ses plus belles années, elle passerait ses vieux jours dans la misère et l'abandon. J'espère que cela n'arrivera pas. Je lui laisse pour protecteur et pour appui tous ceux qui m'ont aimé de mon vivant. Toutefois, si cette assistance venait à lui manquer, je crois pouvoir espérer que mes compatriotes ne lui laisseraient pas mendier son pain. Engagez, je vous supplie, ceux d'entre eux en qui vous connaissez l'âme genevoise à ne jamais la perdre de vue, et à se réunir s'il le fallait pour lui aider à couler ses jours en paix à l'abri de la pauvreté. Euh, voici une lettre pour mon très honoré disciple. Je crois que j'aurais été son maître en amitié, et tout le reste je me serais glorifié de prendre leçon de lui. Je souhaite fort qu'il accepte la proposition de faire la préface du recueil de mes œuvres, et en ce cas, vous voudrez bien faire avec M. le maréchal de Luxembourg des arrangements pour lui faire agréer un présent sur l'édition. Au reste, si les choses ne tournaient pas comme je l'espère pour une édition en France, je n'ai point à me plaindre de la probité de Ray, et je crois qu'il n'y a pas non plus à se plaindre de mes écrits. On pourrait s'adresser à lui. Adieu, de Rechef. Aimez vos devoirs, cher Moultou. Ne cherchez point les vertus éclatantes, élevez avec grand soin vos enfants, édifiez vos nouveaux compatriotes sans ostentation et sans dureté, et pensez quelquefois que la mort perd beaucoup de ses horreurs quand on en approche avec un cœur content de sa vie. Gardez-moi tous deux le secret sur ces lettres, du moins jusqu'après l'événement dont j'ignore encore le temps, quoique sûrement peu éloigné. Je commence par les amis et les affaires pour voir ensuite en repos avec Jean-Jacques si par hasard il n'a rien oublié. Si vous venez, vous trouverez le morceau que je vous destinais parmi ce qu'il me reste encore de petits manuscrits. Si vous ne venez pas et qu'on négligea de vous l'envoyer, vous pouvez le demander car votre nom y est écrit. C'est comme je crois vous l'avoir déjà marqué, une oraison funèbre de feu monsieur le duc d'Orléans. À Monsieur Roustan, ministre du Saint-Évangile à Genève, à Montmorency le 23 décembre 1761. Mon disciple bien-aimé, quand je reçus votre dernière lettre, j'espérais encore vous voir et vous embrasser un jour, mais le ciel en ordonne autrement, il faut nous quitter avant que de nous connaître. Je crois que nous y perdons tous deux. Vous avez du talent, cher Roustan. Quand je finissais ma courte carrière, vous commenciez la vôtre, et j'augurais que vous iriez loin. La gêne de votre situation vous a forcé d'accepter un emploi qui vous éloigne de la culture des lettres. Je ne regarde point cet éloignement comme un malheur pour vous, mon cher Roustan. Pesez bien ce que je vais vous dire. J'ai fait quelques essais de la gloire. Tous mes écrits ont réussi. Pas un homme de lettres vivant, sans en accepter Voltaire, n'a eu des moments plus brillants que les miens. Et cependant, je vous proteste que depuis le moment que j'ai commencé de faire imprimer, ma vie n'a été que peine, angoisse et douleur de toute espèce. Je n'ai vécu tranquille, heureux et n'ai eu de vrais amis que durant mon obscurité. Depuis lors, il a fallu vivre de fumée et tout ce qui pouvait plaire à mon cœur a fui sans retour. Mon enfant, fais-toi petit, disait à son fils cet ancien politique. Et moi, je dis à mon disciple Roustan Mon enfant, Reste obscur. Profite du triste exemple de ton maître. Gardez cette lettre, Roustan, je vous en conjure. Si vous en dédaignez les conseils, vous pourrez réussir sans doute, car encore une fois vous avez du talent, quoique encore mal réglé par la fougue de la jeunesse. Mais si jamais vous avez un nom, relisez ma lettre, et je vous promets que vous ne l'achèverez pas sans pleurer. Votre famille, votre fortune étroite, un émule, tout vous tentera. Résister, et sachez que quoi qu'il arrive, l'indigence est moins dure, moins cruelle à supporter que la réputation littéraire. Toutefois, Voulez-vous faire un essai L'occasion est belle. Le titre dont vous m'honorez vous la fournit, et tout le monde approuvera qu'un tel disciple fasse une préface à la tête du recueil des écrits de son maître. Faites donc cette préface. Faites-la même avec soin. Concertez-vous là-dessus avec moultou. Mais gardez-vous d'aller faire le fade louangeur. Vous feriez plus de tort à votre réputation que du bien à la mienne. Louez-moi d'une seule chose, mais louez-moi de votre mieux, parce qu'elle est louable et belle. C'est d'avoir eu quelques talents et de ne m'être point pressé de le montrer, d'avoir passé sans écrire tout le feu de la jeunesse, d'avoir pris la plume à quarante ans et de l'avoir quitté avant cinquante, car vous savez que telle était ma résolution, et le traité de l'éducation devait être mon dernier ouvrage, quand j'aurais encore vécu cinquante ans. Ce n'est pas qu'il n'y ait un traité du contrat social duquel je n'ai encore parlé à personne, et qui ne paraîtra peut être qu'après l'éducation, mais il lui est antérieur d'un grand nombre d'années. Faites donc cette préface, et, et puis des sermons, et jamais rien de plus. Au surplus, soyez bon père, bon mari, bon régent, bon ministre, bon citoyen, homme simple en toutes choses, et rien de plus, et je vous promets une vie heureuse. Adieu, Roustan. Tel est le conseil de votre maître et ami prêt à quitter la vie, en ce moment où ceux mêmes qui n'ont pas aimé la vérité la disent. Adieu. monsieur de Malzerbe, à Montmorency, le 23 décembre 1761. « Il fut un temps, monsieur, où vous m'honorâtes de votre estime et où je ne m'en sentais pas indigne. Ce temps est passé, je le reconnais enfin, et quoique votre patience et vos bontés envers moi soient inépuisables, je ne puis plus les attribuer à la même cause sans le plus ridicule aveuglement. » Depuis plus de six semaines, ma conduite et mes lettres ne sont qu'un tissu d'iniquité, de folie, d'impertinence. Je vous ai compromis, monsieur, j'ai compromis madame la maréchale de la manière du monde la plus punissable. Vous avez tout enduré, tout fait pour calmer mon délire, et cet excès d'indulgence qui pouvait le prolonger est en effet ce qui l'a détruit. J'ouvre en frémissant les yeux sur moi, et je me vois tout aussi méprisable que je le suis devenu. Devenu Non. L'homme qui porta cinquante ans le cœur que je sens renaître en moi n'est point celui qui puisse oublier au point que je viens de faire. On ne demande point pardon à mon âge parce qu'on n'en mérite plus. Mais, monsieur, je ne prends aucun intérêt à celui qui vient d'usurper et de déshonorer mon nom. Je l'abandonne à votre juste indignation. Mais il est mort pour ne plus renaître. Daignez rendre votre estime à celui qui vous écrit maintenant. Il ne saurait s'en passer et ne méritera jamais de la perdre. Il en a pour garant non sa raison, mais son état qui le met désormais à l'abri des grandes passions. À M. de Malzerbe, à Montmorency, le 4 janvier 1762. J'aurais moins tardé, monsieur, à vous remercier de la dernière lettre dont vous m'avez honoré, si j'avais mesuré ma diligence à répondre sur le plaisir qu'elle m'a fait. Mais outre qu'il m'en coûte beaucoup d'écrire, j'ai pensé qu'il fallait donner quelques jours aux importunités de ces temps-ci pour ne vous pas accabler des miennes. Quoique je ne me console point de ce qui vient de se passer, je suis très content que vous en soyez instruit, puisque cela ne m'a point ôté votre estime. Elle en sera plus à moi quand vous ne me croirez pas meilleur que je ne suis. Les motifs auxquels vous attribuez les partis qu'on m'a vu prendre depuis que je porte une espèce de nom dans le monde me font peut-être plus d'honneur que je n'en mérite mais ils sont certainement plus près de la vérité que ceux que me prêtent ces hommes de lettres qui, donnant tout à la réputation, jugent de mes sentiments par les leurs. J'ai un cœur trop sensible à d'autres attachements pour l'être si fort à l'opinion publique j'aime trop mon plaisir et mon indépendance pour être esclave de la vanité au point qu'ils le supposent. Celui pour qui la fortune et l'espoir de parvenir ne balança jamais un rendez-vous, un souper agréable, ne doit pas naturellement sacrifier son bonheur au désir de faire parler de lui. Il n'est point du tout croyable qu'un homme qui se sent quelque talent, et qui tarde jusqu'à quarante ans à se faire connaître, soit assez sot pour aller s'ennuyer le reste de ses jours dans un désert uniquement pour acquérir la réputation d'un misanthrope. Mais monsieur, quoique je haïs souverainement l'injustice et la méchanceté, cette passion n'est pas assez dominante pour me déterminer seul à fuir la société des hommes, si j'avais en les quittant quelques grands sacrifices à faire. Non. Mon motif est moins noble et plus près de moi. Je suis né avec un amour naturel pour la solitude, qui n'a fait qu'augmenter à mesure que j'ai mieux connu les hommes. Je trouve mieux mon compte avec les êtres chimériques que je rassemble autour de moi qu'avec ceux que je vois dans le monde, et la société, dont mon imagination fait les frais dans ma retraite, achève de me dégoûter de toutes celles que j'ai quittées. Vous me supposez malheureux et consumé de mélancolie. Oh, monsieur, combien vous vous trompez C'est à Paris que je l'étais, c'est à Paris qu'une bile noire rongeait mon cœur, et l'amertume de cette bile ne se fait que trop sentir dans tous les écrits que j'ai publiés tant que j'y suis resté. Mais, monsieur, comparez ces écrits avec ceux que j'ai faits dans ma solitude, où je suis trompé, où vous sentirez dans ces derniers une certaine sérénité d'âme qui ne se joue point, et sur laquelle on peut porter un jugement certain de l'état intérieur de l'auteur. L'extrême agitation que je viens d'éprouver vous a pu faire porter un jugement contraire mais il est facile à voir que cette agitation n'a point son principe dans ma situation actuelle, mais dans une imagination déréglée, prête à s'effaroucher sur tout et à porter tout à l'extrême des succès continus m'ont rendu sensible à la gloire, et il n'y a point d'homme ayant quelque hauteur d'âme et quelque vertu qui pût penser, sans le plus mortel désespoir, qu'après sa mort, on substituerait sous son nom, à un ouvrage utile, un ouvrage pernicieux, capable de déshonorer sa mémoire et de faire beaucoup de mal. Il se peut qu'un tel bouleversement ait accéléré le progrès de mes maux, mais dans la supposition qu'un tel accès de folie m'eût pris à Paris, il n'est point sûr que ma propre volonté n'eût pas épargné le reste de l'ouvrage à la nature. Longtemps je me suis abusé moi même sur la cause de cet invincible dégoût que j'ai toujours éprouvé dans le commerce des hommes, je l'attribuais au chagrin de n'avoir pas l'esprit assez présent pour montrer dans la conversation le peu que j'en ai, et, par contre coup, à celui de ne pas occuper dans le monde la place que j'y croyais mériter. Mais quand, après avoir barbouillé du papier, j'étais bien sûr, même en disant des sottises, de n'être pas pris pour un sot, quand je me suis vu recherché de tout le monde et honoré de beaucoup plus de considération que ma ridicule vanité n'en eût oser prétendre, et que malgré cela j'ai senti ce même dégoût plus augmenté que diminué, j'ai conclu qu'il venait d'une autre cause et que ces espèces de jouissances n'étaient point celles qu'il me fallait. Quelle est enfin cette cause elle n'est autre que cet indomptable esprit de liberté que rien n'a pu vaincre, et devant lequel les honneurs, la fortune et la réputation même ne me sont rien. Il est certain que cet esprit de liberté me vient moins d'orgueil que de paresse. Mais cette paresse est incroyable. Tout les farouches, les moindres devoirs de la vie civile lui sont insupportables. Un mot à dire, une lettre à écrire, une visite à faire, dès qu'il le faut, sont pour moi des supplices. Voilà pourquoi, quoique le commerce ordinaire des hommes me soit odieux, l'intime amitié m'est si chère, parce qu'il n'y a plus de devoir pour elle. On suit son cœur et tout est fait. Voilà encore pourquoi j'ai toujours tant redouté les bienfaits, car tout bienfait exige reconnaissance, et je me sens le cœur ingrat, par cela seul que la reconnaissance est un devoir. « En un mot, l'espèce de bonheur qu'il me faut n'est pas tant de faire ce que je veux que de ne pas faire ce que je ne veux pas. La vie active n'a rien qui me tente. Je consentirais cent fois plus tôt à ne jamais rien faire qu'à faire quelque chose malgré moi, et j'ai cent fois pensé que je n'aurais pas vécu trop malheureux à la Bastille, n'y étant tenu à rien du tout qu'à rester là. J'ai cependant fait dans ma jeunesse quelques efforts pour parvenir. » Mais ces efforts n'ont jamais eu pour but que la retraite et le repos dans ma vieillesse. Et comme ils n'ont été que par secousse, comme ceux d'un paresseux, ils n'ont jamais eu le moindre succès. Quand les mots sont venus, ils m'ont servi d'un beau prétexte pour me livrer ma passion dominante. Trouvant que c'était une folie de me tourmenter pour un âge auquel je ne parviendrais pas, j'ai tout planté là et je me suis dépêché de jouir. Voilà, monsieur, je vous le jure, la véritable cause de cette retraite à laquelle nos gens de lettres ont été chercher des motifs d'ostentation qui supposent une constance, ou plutôt une obstination à tenir à ce qui me coûte, directement contraire à mon caractère naturel. Vous me direz, monsieur, que cette indolence supposée s'accorde mal avec les écrits que j'ai composés depuis dix ans, et avec ce désir de gloire qui a dû m'exciter à les publier, voilà une objection à résoudre qui m'oblige à prolonger ma lettre et qui par conséquent me force à la finir. J'y reviendrai, monsieur, si mon ton familier ne vous déplaît pas. C'est dans l'épanchement de mon cœur que je vous écris. Je n'en saurais prendre un autre. Je me peindrai sans phare et sans modestie. Je me montrerai à vous tel que je me vois et tel que je suis. Car, passant ma vie avec moi, je dois me connaître, et je vois par la manière dont ceux qui pensent me connaître interprètent mes actions et ma conduite, qu'ils n'y connaissent rien. Personne au monde ne me connaît que moi seul. Vous en jugerez quand j'aurai tout dit. Ne me renvoyez point mes lettres, monsieur, je vous supplie. Brûlez-les parce qu'elles ne valent pas la peine d'être gardées, mais non pas par égard pour moi. Ne songez pas non plus de grâce à retirer celles qui sont entre les mains de Duchesne. S'il fallait effacer dans le monde les traces de toutes mes folies, il y aurait trop de lettres à retirer, et je ne remuerais pas le bout du doigt pour cela. À charge et à décharge, je ne crains point d'être vu tel que je suis. Je connais mes grands défauts, et je sens vivement tous mes vices. Avec tout cela, je mourrai plein d'espoir dans le Dieu suprême, et très persuadé que, de tous les hommes que j'ai connus en ma vie, aucun ne fut meilleur que moi. À Monsieur de Malzerbe, à Montmorency le 12 janvier 1762. Je continue, Monsieur, à vous rendre compte de moi, puisque j'ai commencé, car ce qui peut m'être le plus défavorable est d'être connu à demi. Et puisque mes fautes ne m'ont point ôté votre estime, je ne présume pas que ma franchise me la doit voter. Une âme paresseuse qui s'effraie de tout soin, un tempérament ardent, bilieux, facile à s'affecter et sensible à l'excès, à tout ce qui l'affecte, semble ne pouvoir s'allier dans le même caractère, et ces deux contraires composent pourtant le fond du mien. Quoique je ne puisse résoudre cette opposition par des principes, elle existe pourtant, je la sens, rien n'est plus certain, et j'en puis du moins donner par les faits une espèce d'historique qui peut servir à la concevoir. J'ai eu plus d'activité dans l'enfance, mais jamais comme un autre enfant. Cet ennui de tout m'a de bonheur jeté dans la lecture. À six ans plus tard que me tomba sous la main, à huit, je le savais par cœur. J'avais lu tous les romans. Il m'avait fait verser des sauts de larmes avant l'âge où le cœur prend intérêt au roman. De là se forma dans le mien ce goût héroïque et romanesque qui n'a fait qu'augmenter jusqu'à présent et qui acheva de me dégoûter de tout, hors de ce qui ressemblait à mes folies. Dans ma jeunesse, je croyais trouver dans le monde les mêmes gens que j'avais connus dans mes livres. Je me livrais sans réserve à quiconque savait m'en imposer par un certain jargon dont j'ai toujours été la dupe. J'étais actif parce que j'étais fou. À mesure que j'étais détrompé, je changeais de goût, d'attachement, de projet, et dans tous ces changements, je perdais toujours ma peine et mon temps parce que je cherchais toujours ce qui n'était point. En devenant plus expérimenté, j'ai perdu peu à peu l'espoir de le trouver, et par conséquent le zèle de le chercher. Aigri par les injustices que j'avais éprouvées, par celles dont j'avais été le témoin, souvent affligé du désordre où l'exemple et la force des choses m'avaient entraîné moi-même, j'ai pris en mépris mon siècle et mes contemporains, et sentant que je ne trouverais point au milieu d'eux une situation qui pût contenter mon cœur, je l'ai peu à peu détachée de la société des hommes, et je m'en suis fait une autre, dans mon imagination, laquelle m'a d'autant plus charmée que je la pouvais cultiver sans peine, sans risque, et la trouver toujours sûre et telle qu'il me la fallait. Après avoir passé quarante ans de ma vie ainsi mécontent de moi même et des autres, je cherchais inutilement à rompre les liens qui me tenaient attachés à cette société que j'estimais si peu, et qui m'enchaînait aux occupations le moins de mon goût par des besoins que j'estimais ceux de la nature et qui n'étaient que ceux de l'opinion. Tout à coup, un heureux hasard vint m'éclairer sur ce que j'avais à faire pour moi-même et à penser de mes semblables, sur lesquels mon cœur était sans cesse en contradiction avec mon esprit, et que je me sentais encore porté à aimer avec tant de raisons de les haïr. Je voudrais, monsieur, vous pouvoir peindre ce moment qui a fait dans ma vie une si singulière époque et qui me sera toujours présent quand je vivrai éternellement. J'allais voir Diderot, alors prisonnier à Vincennes. J'avais dans ma poche un Mercure de France que je me mis à feuilleter le long du chemin. Je tombe sur la question de l'Académie de Dijon qui a donné lieu à mon premier écrit. Si jamais quelque chose a ressemblé à une inspiration subite, c'est le mouvement qui se fit en moi à cette lecture. Tout à coup, je me sens l'esprit ébloui de mille lumières. Des foules d'idées vives s'y présentèrent à la fois avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable. Je sens ma tête prise par un étourdissement semblable à l'ivresse. Une violente palpitation m'oppresse, soulève ma poitrine. Ne pouvant plus respirer en marchant, je me laisse tomber sous un des arbres de l'avenue, et j'y passe une demi-heure dans une telle agitation qu'en me relevant, j'aperçus tout le devant de ma veste mouillée de mes larmes sans avoir senti que j'en répandais. Oh, monsieur, si j'avais jamais pu écrire le quart de ce que j'ai vu et senti sous cet arbre, avec quelle clarté j'aurais fait voir toutes les contradictions du système social, avec quelle force j'aurais exposé tous les abus de nos institutions, avec quelle simplicité j'aurais démontré que l'homme est bon naturellement, et que c'est par ces institutions seules que les hommes deviennent méchants. Tout ce que j'ai pu retenir de ces foules de grandes vérités, qui dans un quart d'heure m'illuminèrent sous cet arbre, a été bien faiblement épars dans les trois principaux de mes écrits, euh, savoir ce premier discours, celui sur l'inégalité, et le traité de l'éducation, lesquels trois ouvrages sont inséparables et forment ensemble un même tout. Tout le reste a été perdu, et il n'y eut d'écrit sur le lieu même que la prosopopée de Fabricius. Voilà comment, lorsque j'y pensais le moins, je devins auteur presque malgré moi. Il est aisé de concevoir comment l'attrait d'un premier succès et les critiques des barbouilleurs me jetèrent tout de bon dans la carrière. Avais-je quelque vrai talent pour écrire Je ne sais. Une vive persuasion m'a toujours tenu lieu d'éloquence, et j'ai toujours écrit lâchement et mal quand je n'ai pas été fortement persuadé. Ainsi c'est peut-être un retour caché d'amour-propre qui m'a fait choisir et mériter ma devise et m'a si passionnément attaché à la vérité ou à tout ce que j'ai pris pour elle. Si je n'avais écrit que pour écrire, je suis convaincu qu'on ne m'aurait jamais lu. Après avoir découvert ou cru découvrir dans les fausses opinions des hommes la source de leur misère et de leur méchanceté, je sentis qu'il n'y avait que ces mêmes opinions qui m'eussent rendu malheureux moi-même, et que mes maux et mes vices me venaient bien plus de ma situation que de moi-même. Dans le même temps, une maladie dont j'avais dès l'enfance senti les premières atteintes s'étant déclarée absolument incurable, malgré toutes les promesses des fous guérisseurs dont je n'ai pas été longtemps la dupe, je jugeais que si je voulais être conséquent et secouer une fois de dessus mes épaules le pesant joug de l'opinion je n'avais pas un moment à perdre je pris brusquement mon parti avec assez de courage et je les assez bien soutenus jusqu'ici avec une fermeté dont moi seul peux sentir le prix parce qu'il n'y a que moi seul qui sache quels obstacles j'ai eus et j'ai encore tous les jours à combattre pour me maintenir sans cesse contre le courant je sens pourtant bien que depuis dix ans j'ai un peu dérivé, mais si j'estimais seulement en avoir encore quatre à vivre, on me verrait donner une deuxième secousse et remonter tout au moins à mon premier niveau pour n'en plus guère redescendre, car toutes les grandes épreuves sont faites. Et il est désormais démontré pour moi, par l'expérience, que l'état où je me suis mis est le seul où l'homme puisse vivre bon et heureux, puisqu'il est le plus indépendant de tous, et le seul où l'on ne se trouve jamais pour son propre avantage dans la nécessité de nuire à autrui. J'avoue que le nom que m'ont fait mes écrits a beaucoup facilité l'exécution du parti que j'ai pris. Il faut être cru bon auteur pour se faire impunément mauvais copiste et ne pas manquer de travail pour cela sans ce premier titre on m'eût pu trop prendre au mot sur l'autre et peut-être cela m'aurait-il mortifié car je brave aisément le ridicule mais je ne supporterais pas si bien le mépris mais si quelque réputation me donne à cet égard un peu davantage il est bien compensé par tous les inconvénients attachés à cette même réputation quand on n'en veut point être esclave et qu'on veut vivre isolé et indépendant ce sont ces inconvénients, en partie, qui m'ont chassé de Paris et qui, me poursuivant encore dans mon asile, me chasseraient très certainement plus loin pour peu que ma santé vint à se raffermir. Un autre de mes fléaux dans cette grande ville était ces foules de prétendus amis qui s'étaient emparés de moi et qui, jugeant de mon cœur par les leurs, voulaient absolument me rendre heureux à leur mode et non pas à la mienne. Au désespoir de ma retraite, ils m'y ont poursuivi pour m'en tirer. Je n'ai pu m'y maintenir sans tout rompre. Je ne suis vraiment libre que depuis ce temps-là. Libre Non, je ne le suis point encore. Mes derniers écrits ne sont point encore imprimés, et vu le déplorable état de ma pauvre machine, je n'espère plus survivre à l'impression du recueil de tous. Mais si, contre mon attente, je puis aller jusque-là et prendre une fois congé du public croyez monsieur qu'alors je serai libre ou que jamais homme ne l'aura été oh utinam oh jour trois fois heureux non il ne me sera pas donné de le voir je n'ai pas tout dit monsieur et vous aurez peut-être encore au moins une lettre à essuyer Heureusement, rien ne vous oblige de les lire, et peut-être y seriez-vous bien embarrassé. Mais pardonnez de grâce, pour recopier ces longs fatras, il faudrait les refaire, et en vérité, je n'en ai pas le courage. J'ai sûrement bien du plaisir à vous écrire, mais je n'en ai pas moins à me reposer, et mon état ne me permet pas d'écrire longtemps de suite. À M. de Malesherbes, à Montmorency, le 26 janvier 1762. Après vous avoir exposé, monsieur, les vrais motifs de ma conduite, je voudrais vous parler de mon état moral dans ma retraite. Mais je sens qu'il est bien tard. Mon âme aliénée d'elle-même est tout à mon corps. Le délabrement de ma pauvre machine l'y tient de jour en jour plus attachée, et jusqu'à ce qu'elle s'en sépare enfin tout à coup. C'est de mon bonheur que je voudrais vous parler. Et l'on parle mal du bonheur quand on souffre. Mes mots sont l'ouvrage de la nature, mais mon bonheur est le mien. Quoi qu'on en puisse dire, j'ai été sage, puisque j'ai été heureux autant que ma nature m'a permis de l'être. Je n'ai point été chercher ma félicité au loin, je l'ai cherchée auprès de moi, et l'y ai trouvée. Spartien dit que Similis, courtisan de Trajan, ayant sans aucun mécontentement personnel quitté la cour et tous ses emplois pour aller vivre paisiblement à la campagne, fit mettre ces mots sur sa tombe. J'ai demeuré soixante et seize ans sur la terre et j'en ai vécu sept. Voilà ce que je puis dire à quelque égard, quoique mon sacrifice ait été moindre. Je n'ai commencé à vivre que le 9 avril 1756. Je ne saurais vous dire, monsieur, combien j'ai été touché de voir que vous m'estimiez le plus malheureux des hommes. Le public sans doute en jugera comme vous, et c'est encore ce qui m'afflige. Oh, que le sort dont j'ai joui n'est-il connu de tout l'univers Chacun voudrait s'en faire un semblable La paix régnerait sur la terre, les hommes ne songeraient plus à se nuire, et il n'y aurait plus de méchants quand nul n'aurait intérêt à l'être Mais de quoi jouissais-je enfin quand j'étais seul De moi De l'univers entier de tout ce qui est, de tout ce qui peut être, de tout ce qu'a de beau le monde sensible et d'imaginable le monde intellectuel, je rassemblais autour de moi tout ce qui pouvait flatter mon cœur, mes désirs étaient la mesure de mes plaisirs, non, jamais les plus voluptueux n'ont connu de pareilles délices, et j'ai cent fois plus joui de mes chimères qu'ils ne font des réalités. Quand mes douleurs me font tristement mesurer la longueur des nuits, et que l'agitation de la fièvre m'empêche de goûter un seul instant de sommeil, souvent je me distrais de mon état présent en songeant aux divers événements de ma vie, et les repentir, les doux souvenirs, les regrets, l'attendrissement se partagent le soin de me faire oublier quelques moments mes souffrances. Quel temps, croiriez vous, monsieur, que je me rappelle le plus souvent et le plus volontiers dans mes rêves? Ce ne sont point les plaisirs de ma jeunesse ils furent trop rares, trop mêlés d'amertume, et sont déjà trop loin de moi. Ce sont ceux de ma retraite, ce sont mes promenades solitaires, ce sont ces jours rapides mais délicieux que j'ai passés tout entier avec moi seul, avec ma bonne et simple gouvernante, avec mon chien bien-aimé, ma vieille chatte avec les oiseaux de la campagne et les biches de la forêt, avec la nature entière et son inconcevable hauteur en me levant avant le soleil pour aller voir contempler son lever dans mon jardin quand je voyais commencer une belle journée, mon premier souhait était que ni lettres ni visite n'en vinssent troubler le charme. Après avoir donné la matinée à divers soins que je remplissais tous avec plaisir parce que je pouvais les remettre à un autre temps, je me hâtais de dîner pour échapper aux importuns et me ménager un plus long après-midi. Avant une heure, même les jours les plus ardents, je partais par le grand soleil avec le fidèle achat, pressant le pas dans la crainte que quelqu'un ne vînt s'emparer de moi avant que j'eusse pu m'esquiver. Mais quand une fois j'avais pu doubler un certain coin, avec quel battement de cœur, avec quel pétiment de joie je commençais à respirer en me sentant sauvé, en me disant me voilà maître de moi pour le reste de ce jour. J'allais alors d'un pas plus tranquille chercher quelque lieu sauvage dans la forêt, quelque lieu désert où rien ne montrant la main des hommes n'annonça la servitude et la domination quelque asile où je pusse croire avoir pénétré le premier et où nul tiers importun ne vint s'interposer entre la nature et moi. C'était là qu'elle semblait déployer à mes yeux une magnificence toujours nouvelle. L'or des et la pourpre des bruyères frappaient mes yeux d'un luxe qui touchait mon cœur. La majesté des arbres qui me couvraient de leur ombre, la délicatesse des arbustes qui m'environnaient, l'étonnante variété des herbes et des fleurs que je foulais sous mes pieds tenaient mon esprit dans une alternative continuelle d'observation et d'admiration. Le concours de tant d'objets intéressants qui se disputaient mon attention, m'attirant sans cesse de l'un à l'autre, favorisait mon humeur rêveuse et paresseuse, et me faisait souvent redire en moi-même, non, Salomon dans toute sa gloire ne fut jamais vêtu comme l'un d'eux. Mon imagination ne laissait pas longtemps déserte la terre ainsi parée. Je la peuplai bientôt d'êtres selon mon cœur, et, chassant bien loin l'opinion, les préjugés, toutes les passions factices, je transportais dans les asiles de la nature des hommes dignes de les habiter. Je m'en formais une société charmante dont je ne me sentais pas indigne. Je me faisais un siècle d'or à ma fantaisie et, remplissant ces beaux jours de toutes les scènes de ma vie qui m'avaient laissé de doux souvenirs et de toutes celles que mon cœur pouvait désirer encore, je m'attendrissais jusqu'aux larmes sur les vrais plaisirs de l'humanité, plaisirs si délicieux, si purs et qui sont désormais si loin des hommes. Oh. Si dans ces moments quelque idée de Paris, de mon siècle et de ma petite gloriole d'auteur venait troubler mes rêveries, avec quel dédain je la chassais à l'instant pour me livrer sans distraction aux sentiments exquis dont mon âme était pleine. Cependant, au milieu de tout cela, je l'avoue, le néant de mes chimères venait quelquefois la contrister tout à coup quand tous mes rêves se seraient tournés en réalité, il ne m'aurait pas suffi. J'aurais imaginé, rêvé, désiré encore. Je trouvais en moi un vide inexplicable, que rien n'aurait pu remplir, un certain élancement de cœur vers une autre sorte de jouissance dont je n'avais pas d'idée et dont pourtant je sentais le besoin. Eh bien, monsieur, cela même était jouissance, puisque j'en étais pénétré d'un sentiment très vif et d'une tristesse attirante que je n'aurais pas voulu ne pas avoir. Bientôt, de la surface de la terre, j'élevais mes idées à tous les êtres de la nature, au système universel des choses, à l'être incompréhensible qui embrasse tout. Alors, l'esprit perdu dans cette immensité, je ne pensais pas, je ne raisonnais pas, je ne philosophais pas, je me sentais avec une sorte de volupté accablé du poids de cet univers, je me livrais avec ravissement à la confusion de ces grandes idées, j'aimais à me perdre en imagination dans l'espace. Mon cœur, resserré dans les bornes des êtres, s'y trouvait trop à l'étroit, j'étouffais dans l'univers, j'aurais voulu mélancer dans l'infini je crois que si j'eusse dévoilé tous les mystères de la nature, je me serais senti dans une situation moins délicieuse que cette étourdissante extase à laquelle mon esprit se livrait sans retenue et qui, dans l'agitation de mes transports, me faisait écrier quelquefois, ô oh, grand être, grand être sans pouvoir dire ni penser rien de plus. Ainsi s'écoulaient dans un délire continuel les journées les plus charmantes que jamais créature humaine ait passées. Et quand le coucher du soleil me faisait songer à la retraite, étonné de la rapidité du temps, je croyais n'avoir pas assez mis à profit ma journée. Je pensais en pouvoir jouir davantage encore. Et pour réparer le temps perdu, je me disais je reviendrai demain. Je revenais à petits pas, la tête un peu fatiguée, mais le cœur content. Je me reposais agréablement au retour, en me livrant à l'impression des objets, mais sans penser, sans imaginer, sans rien faire autre chose que sentir le calme et le bonheur de ma situation. Je trouvais mon couvert mis sur la terrasse. Je soupais de grand appétit dans mon petit domestique. Nulle image de servitude et de dépendance ne troublait la bienveillance qui nous unissait tous. Mon chien lui même était mon ami, non mon esclave. Nous avions toujours la même volonté, mais jamais il ne m'a obéi. Ma gaieté durant toute la soirée témoignait que j'avais vécu seul tout le jour. J'étais bien différent quand j'avais vu de la compagnie. J'étais rarement content des autres et jamais de moi. Le soir j'étais grondeur et taciturne. Cette remarque est de ma gouvernante, et depuis qu'elle me l'a dite, je l'ai toujours trouvée juste en m'observant. Enfin, après avoir fait encore quelques tours dans mon jardin ou chanté quelques airs sur mon épinette, je trouvais dans mon lit un repos de corps et d'âme cent fois plus doux que le sommeil même. Ce sont là les jours qui ont fait le vrai bonheur de ma vie, bonheur sans amertume, sans ennui, sans regret, et auquel j'aurais borné volontiers tout celui de mon existence. Oui, monsieur, que de pareils jours remplissent pour moi l'éternité, je n'en demande point d'autres, et n'imagine pas que je sois beaucoup moins heureux dans ces ravissantes contemplations que les intelligences célestes. Mais un corps qui souffre ôte à l'esprit sa liberté désormais je ne suis plus seul, j'ai un hôte qui m'importune, il faut m'en délivrer pour être à moi, et l'essai que j'ai fait de ces douces jouissances ne sert plus qu'à me faire attendre, avec moins d'effroi, le moment de les goûter sans distraction. Mais me voici déjà à la fin de ma seconde feuille. Il m'en faudrait pourtant encore une. encore une lettre donc. Et, et puis plus. Pardon, monsieur, quoique j'aime trop à parler de moi. Je n'aime pas à en parler avec tout le monde. C'est ce qui me fait abuser de l'occasion quand je l'ai et qu'elle me plaît. Voilà mon tort et mon excuse. Je vous prie de la prendre en gré. À M. de Malzerbe, à Montmorency, le 28 janvier 1762. Je vous ai montré, monsieur, dans le secret de mon cœur, les vrais motifs de ma retraite et de toute ma conduite motifs bien moins nobles sans doute que vous ne les avez supposés, mais tels pourtant qu'ils me rendent content de moi même et m'inspirent la fierté d'âme d'un homme qui se sent bien ordonné et qui, ayant eu le courage de faire ce qu'il fallait pour l'être, croit pouvoir s'en imputer le mérite. Il dépendait de moi non de me faire un autre tempérament ni un autre caractère, mais de tirer parti du mien pour me rendre bon à moi-même et nullement méchant aux autres. C'est beaucoup que cela, monsieur, et peu d'hommes en peuvent dire autant. Aussi je ne vous déguiserai point que malgré le sentiment de mes vices, j'ai pour moi une haute estime. Vos gens de lettres ont beau crier qu'un homme seul est inutile à tout le monde et ne remplit pas ses devoirs dans la société, j'estime moi, les paysans de Montmorency, des membres plus utiles à la société que tous ces tas de désœuvrés payés de la graisse du peuple pour aller la semaine bavarder dans une académie, et je suis plus content de pouvoir dans l'occasion faire quelques plaisir à mes pauvres voisins que d'aider à parvenir à ces foules de petits intrigants dont Paris est plein qui tous aspirent à l'honneur d'être des fripons en place, et que, pour le bien public ainsi que pour le leur, on devrait tous renvoyer labourer la terre dans leur province. C'est quelque chose que de donner l'exemple aux hommes de la vie qu'ils devraient tous mener. C'est quelque chose quand on n'a plus ni force ni santé pour travailler de ses bras, d'oser de sa retraite faire entendre la voix de la vérité, c'est quelque chose d'avertir les hommes de la folie des opinions qui les rendent misérables, c'est quelque chose d'avoir pu contribuer à empêcher ou différer au moins dans ma patrie l'établissement pernicieux que, pour faire sa cour à Voltaire à nos dépens, D'Alembert voulait qu'on fît parmi nous. Si j'eusse vécu dans Genève, je n'aurais pu ni publier l'épître dédicatoire du discours sur l'inégalité, ni parler même contre l'établissement de la comédie du ton que je l'ai fait. Je serais beaucoup plus inutile à mes compatriotes vivant au milieu d'eux que je ne puis l'être dans l'occasion de ma retraite. Qu'importe en quel lieu j'habite, si j'agis, où je dois agir. D'ailleurs, les habitants de Montmorency sont-ils moins hommes que les Parisiens? Et quand je puis en dissuader quelqu'un d'envoyer son enfant se corrompre à la ville, fais-je moins de bien que si je pouvais de la ville le renvoyer au foyer paternel? Mon indigence seule ne m'empêcherait-elle pas d'être inutile de la manière que tous ces beaux parleurs l'entendent Et puisque je ne mange de pain qu'autant que j'en gagne, ne suis-je pas forcé de travailler pour ma subsistance et de payer à la société tout le besoin que je puis avoir d'elle il est vrai que je me suis refusé aux occupations qui ne m'étaient pas propres, ne me sentant point le talent qui pouvait me faire mériter le bien que vous m'avez voulu faire, l'accepter eût été le voler à quelque homme de l'être aussi indigent que moi et plus capable de ce travail-là. En me l'offrant, vous supposiez que j'étais en état de faire un extrait, que je pouvais m'occuper de matières qui m'étaient indifférentes, et cela n'étant pas, je vous aurais trompé. Je me serais rendu indigne de vos bontés en me conduisant autrement que je n'ai fait. On n'est jamais excusable de faire mal ce qu'on fait volontairement. Je serais maintenant mécontent de moi, et vous aussi, et je ne goûterais pas le plaisir que je prends à vous écrire. Enfin, tant que mes forces me l'ont permis, en travaillant pour moi, j'ai fait, selon ma portée, tout ce que j'ai pu pour la société. Si j'ai peu fait pour elle, j'en ai encore moins exigé, et je me crois si bien quitte avec elle dans l'état où je suis, que si je pouvais désormais me reposer tout à fait et vivre pour moi seul, je le ferais sans scrupule. J'écarterais du moins de moi, de toutes mes forces, l'opportunité du bruit public. Quand je vivrai encore cent ans, je n'écrirai pas une ligne pour la presse, et ne croirai vraiment recommencer à vivre que quand je serai tout à fait oublié. J'avoue pourtant qu'il a tenu à peu que je ne me sois trouvé engagé dans le monde et que je n'ai abandonné ma solitude non par dégoût pour elle mais par un goût non moins vif que j'ai failli lui préférer. Il faudrait, monsieur, que vous connussiez l'état de délaissement et d'abandon de tous mes amis où je me trouvais et la profonde douleur dont mon âme en était affectée lorsque monsieur et madame de Luxembourg désirèrent de me connaître pour juger de l'impression que firent sur mon cœur affligé leurs avances et leurs caresses. J'étais mourant sans eux je serais infailliblement mort de tristesse ils m'ont rendu la vie il est bien juste que je l'emploie à les aimer. J'ai un cœur très aimant, mais qui peut se suffire à lui même. J'aime trop les hommes pour avoir besoin de choix parmi eux. Je les aime tous, et c'est parce que je les aime que je hais l'injustice. C'est parce que je les aime que je les fuis. Je souffre moins de leurs maux quand je ne les vois pas. Cet intérêt pour l'espèce suffit pour nourrir mon cœur. Je n'ai pas besoin d'amis particuliers, mais quand j'en ai, j'ai grand besoin de ne les pas perdre, car quand ils se détachent, ils me déchirent. En cela, d'autant plus coupable que je ne leur demande que de l'amitié et que, pourvu qu'ils m'aiment et que je le sache, je n'ai pas besoin de les voir. Mais ils ont toujours voulu mettre à la place du sentiment, des soins et des services que le public voyait et dont je n'avais que faire. Quand je les aimais, ils ont voulu paraître m'aimer. Pour moi qui dédaigne en tout les apparences, je ne m'en suis pas contenté, et ne trouvant que cela, je me le suis tenu pour dit. Ils n'ont pas précisément cessé de m'aimer. J'ai seulement découvert qu'ils ne m'aimaient pas. Pour la première fois de ma vie, je me trouvais donc tout à coup le cœur seul, et cela seul aussi dans ma retraite et presque aussi malade que je le suis aujourd'hui. C'est dans ces circonstances que commença ce nouvel attachement qui m'a si bien dédommagé de tous les autres, et dont rien ne me dédommagera, car il durera, j'espère, autant que ma vie, et quoi qu'il arrive, il sera le dernier. Je ne puis vous dissimuler, monsieur, que j'ai une violente aversion pour les États qui dominent les autres. J'ai même tort de dire que je ne puis vous le dissimuler, car je n'ai nulle peine à vous l'avouer, à vous, né d'un sang illustre, fils du chancelier de France et premier président d'une cour souveraine. Oui, « Monsieur, à vous, qui m'avez fait mille biens sans me connaître, et à qui, malgré mon ingratitude naturelle, il ne m'en coûte rien d'être obligé, je hais les grands, je hais leur état, leur dureté, leurs préjugés, leur petitesse et tous leurs vices, et je les haïrais bien davantage si je les méprisais moins. C'est avec ce sentiment que j'ai été comme entraîné au château de Montmorency. J'en ai vu les maîtres. Ils m'ont aimé, et moi, monsieur, je les ai aimés, et les aimerai tant que je vivrai de toutes les forces de mon âme. Je donnerai pour eux, je ne dis pas ma vie, le don serait faible dans l'état où je suis, je ne dis pas ma réputation parmi mes contemporains dont je ne me soucie guère, mais la seule gloire qui jamais ait touché mon cœur, l'honneur que j'attends de la postérité, et qu'elle me rendra parce qu'il m'est dû, et que la postérité est toujours juste. Mon cœur, qui ne sait point s'attacher à demi, s'est donné à eux sans réserve, et je ne m'en repens pas. Je m'en repentirais même inutilement, car il ne serait plus temps de m'en dédire. Dans la chaleur de l'enthousiasme qu'ils m'ont inspiré, j'ai cent fois été sur le point de leur demander un asile dans leur maison pour y passer le reste de mes jours auprès d'eux, et ils me l'auraient accordé avec joie, si même à la manière dont ils s'y sont pris, je ne dois pas me regarder comme ayant été prévenu par leurs offres ce projet est certainement un de ceux que j'ai médité depuis longtemps et avec le plus de complaisance cependant il a fallu sentir à la fin malgré moi qu'il n'était pas bon je ne pensais qu'à l'attachement des personnes sans songer aux intermédiaires qui nous auraient tenus éloignés et il y en avait de, tant de sortes surtout dans la commodité attachée à mes mots qu'un tel projet n'est excusable que par le sentiment qu'il avait inspiré D'ailleurs, la manière de vivre qu'il aurait fallu prendre choque très directement tous mes goûts, toutes mes habitudes. Je n'y aurais pas pu résister seulement trois mois. Enfin, nous aurions eu beau nous rapprocher d'habitation, la distance restant toujours la même entre les États. Cette intimité délicieuse qui fait le plus grand charme d'une étroite société eût toujours manqué à la nôtre. Je n'aurais été ni l'ami ni le domestique de M. le maréchal de Luxembourg. J'aurais été son hôte. En me sentant hors de chez moi, j'aurais soupiré souvent après mon ancien asile, et il vaut mieux cent fois être éloigné des personnes qu'on aime et désirer être auprès d'elles que de s'exposer à faire un souhait opposé. Quelques degrés plus rapprochés eussent peut-être fait révolution dans ma vie. J'ai cent fois supposé dans mes rêves monsieur de Luxembourg, point duc, point maréchal de France, mais bon gentilhomme de campagne, habitant quelques vieux châteaux, et Jean-Jacques Rousseau, point auteur, point faiseur de livres, mais ayant un esprit médiocre et un peu d'argent, se présentant au seigneur châtelain et à la dame, leur agréant, trouvant auprès d'eux le bonheur de sa vie et contribuant au leur. Si, pour rendre le rêve plus agréable, vous me permettiez de pousser d'un coup d'épaule le château de Malzerbe, à demi-lieu de là, et il me semble, monsieur, qu'en rêvant de cette manière, je n'aurais de longtemps envie de me réveiller. Mais, c'en est fait, il ne me reste plus qu'à terminer le long rêve, car les autres sont désormais tous hors de saison, et c'est beaucoup si je puis me promettre encore quelques-unes des heures délicieuses que j'ai passées au château de Montmorency. Quoi qu'il en soit, me voilà tel que je me sens affecté. Jugez-moi sur tout ce fatras si j'en vaux la peine, car je n'y saurais mettre plus d'ordre et je n'ai pas le courage de recommencer. Si ce tableau trop véridique m'ôte votre bienveillance, j'aurais cessé d'usurper ce qui ne m'appartenait pas. Mais si je la conserve, elle m'en deviendra plus chère comme en étant plus à moi. À Madame la Marquise de Créqui, à Montmorency, le 7 juin 1762. Je vous remercie, madame, de la vie que vous voulez bien me donner. On me le donne de toutes parts, mais il n'est pas de mon usage. Jean-Jacques Rousseau ne sait point se cacher. D'ailleurs, je vous avoue qu'il m'est impossible de concevoir à quel titre un citoyen de Genève, imprimant un livre en Hollande, avec privilège des États généraux, en peut devoir compte au Parlement de Paris. Au reste, j'ai rendu gloire à Dieu et parlé pour le bien des hommes. Pour une si digne cause, je ne refuserai jamais de souffrir. Je vous réitère mes remerciements, madame, et n'oublierai point ce soin de votre amitié. Sixième partie. L'exil. Motier, l'île de Saint-Pierre. 1762-1765. À Monsieur le Maréchal de Luxembourg, à Yverdon le 15 juin 1762. Enfin j'ai mis le pied dans cette terre de justice et de liberté qu'il ne fallait jamais quitter. Je ne puis écrire aujourd'hui, il était temps d'arriver. Mon adresse sous le couvert de monsieur Daniel Roguin à Yverdon en Suisse. Les lettres ne parviennent ici qu'affranchies jusqu'à la frontière. De grâce monsieur le maréchal, un mot de mademoiselle Levasseur. J'attends sa résolution pour prendre la mienne. À mademoiselle Levasseur. Yverdon, le 17 juin 1762. Ma chère enfant, vous apprendrez avec grand plaisir que je suis en sûreté. Puissé-je apprendre bientôt que vous vous portez bien et que vous m'aimez toujours Je me suis occupé de vous en partant et durant tout mon voyage. Je m'occupe à présent du soin de nous réunir. Voyez ce que vous voulez faire et ne suivez en cela que votre inclination car quelque répugnance que j'ai à me séparer de vous après avoir si longtemps vécu ensemble je le puis cependant sans inconvénient quoique avec regret et même votre séjour en ce pays trouve des difficultés qui ne m'arrêteront pourtant pas s'il vous convient d'y venir consultez-vous donc ma chère enfant et voyez si vous pourrez supporter ma retraite si vous venez, je tâcherai de vous la rendre douce, et je pourvoirai même, autant qu'il sera possible, à ce que vous puissiez remplir les devoirs de votre religion aussi souvent qu'il vous plaira. Mais si vous aimez mieux rester, faites-le sans scrupule, et je concourrai toujours de tout mon pouvoir à vous rendre la vie commode et agréable. Je ne sais rien de ce qui se passe, mais les iniquités du Parlement ne peuvent plus me surprendre, et il n'y a point d'horreur auquel je ne sois déjà préparé. Mon enfant, ne me méprisez pas à cause de ma misère. Les hommes peuvent me rendre malheureux, mais ils ne sauraient me rendre méchant ni injuste, et vous savez mieux que personne que je n'ai rien fait contre les lois. J'ignore comment on aura disposé des effets qui sont restés dans ma maison. J'ai toute confiance en la complaisance qu'a eue Monsieur Dumoulin de vouloir bien en être le gardien. Je crois que cela pourra lever bien des difficultés que d'autres auraient pu faire. Je ne... Présume pas que le Parlement, tout injuste qu'il est, ait la bassesse de confisquer mes guenilles. Cependant, si cela arrivait, venez avec rien, mon enfant, et je serai consolé de tout quand je vous aurai près de moi. Si, comme je le crois, on ferme les yeux et qu'on vous laisse disposer de tout, consultez messieurs Matas, du Moulin, de la Roche, sur la manière de vous défaire de tout cela ou de la plus grande partie, surtout des livres et des gros meubles dont le transport coûterait plus qu'ils ne valent. Et vous ferez emballer le reste avec soin, afin qu'il me soit envoyé par une voie qui est connue de monsieur le maréchal. Mais avant tout, vous tâcherez de me faire parvenir une malle pleine de linge et de hardes dont j'ai un très grand besoin, donnant avec la malle un mémoire exact de tout ce qu'elle contient. Si vous venez, vous garderez ce qu'il y a de meilleur et qui occupe le moins de volume pour l'apporter avec vous, ainsi que l'argent que le reste aura produit, dont vous vous servirez pour votre voyage. Si cela, joint à la pointe du compte de M. de La Roche, excède ce qui est nécessaire, vous le convertirez en lettre de change par le banquier qui dirigera votre voyage. Car contre mon attente, j'ai trouvé qu'il faisait ici très cher vivre, que tout coûtait beaucoup, et que s'il faut nous remonter absolument en meubles et hardes, ce ne sera pas une petite affaire. Euh, vous savez qu'il y a l'épinette et quelques livres à restituer, et M. Mattas et le boucher et mon barbier à payer. Je vous enverrai un mémoire sur tout cela. Vous avez dû trouver dans le couvercle de la boîte aux bonbons trois ou quatre écus qui doivent suffire pour le paiement du boucher. Je ne suis pas encore déterminé sur l'asile que je choisirai dans ce pays. J'attends votre réponse pour me fixer, car si vous ne veniez pas, je m'arrangerais différemment. « Je vous prie de témoigner à messieurs Matas et Dumoulin, à madame de Verdelin, à messieurs Alamani et Mandart, à madame et monsieur de la Roche, et généralement à toutes les personnes qui vous paraîtront s'intéresser à mon sort, combien il m'en a coûté pour quitter si brusquement tous mes amis en un pays où j'étais bien voulu. Vous savez le vrai motif de mon départ. Si personne n'eût été compromis dans cette malheureuse affaire, je ne serais sûrement jamais parti n'ayant rien à me reprocher. » Ne manquez pas aussi de voir de ma part monsieur le curé, de lui marquer avec quelle édification j'ai toujours admiré son zèle et toute sa conduite, et combien j'ai regretté de m'éloigner d'un pasteur si respectable dont l'exemple me rendait meilleur. M. Alamani avait promis de me faire faire un bandage semblable à un modèle qu'il m'a montré, excepté que ce qui était à droite devait être à gauche, je pense que ce bandage peut très bien se faire sur mesure exacte, en n'ouvrant pas les boutonnières, en sorte que je les pourrais faire ouvrir ici à ma mesure. S'il voulait bien prendre la peine de m'en faire deux semblables, je lui en serais sensiblement obligé. Vous auriez soin de lui en rembourser le prix, et de me les envoyer dans la première malle que vous me ferez parvenir. N'oubliez pas aussi les étuis à bougie, et soyez attentive à envelopper le tout avec le plus grand soin. Adieu, ma chère enfant. Je me console un peu des embarras où je vous laisse par les bontés et la protection de monsieur le maréchal et de madame la maréchale qui ne vous abandonneront pas aux besoins. Monsieur et madame Dubetier m'ont paru bien disposés pour vous. Je souhaiterais que vous fissiez les avances d'un raccommodement auquel ils se prêteront sûrement. Que ne puis-je les raccommoder d'eux-mêmes avec monsieur et madame de la Roche. Si j'ai été resté, j'aurais tenté cette bonne œuvre et j'ai dans l'esprit que j'aurais réussi. Adieu de Rochef je vous recommande toutes choses, mais surtout de vous conserver et de prendre soin de vous. À milord de maréchal. Vitam impendere vero. Milord, un pauvre auteur proscrit de France, de sa patrie, du canton de Berne pour avoir dit ce qu'il pensait être utile et bon, vient chercher un asile dans les états du roi. Milord, ne me l'accordez pas si je suis coupable, car je ne demande point grâce et ne crois point en avoir besoin. Mais si je ne suis qu'opprimé, il est digne de vous et de sa majesté de ne pas me refuser le feu et l'eau qu'on veut m'ôter par toute la terre. J'ai cru devoir déclarer ma retraite et mon nom être connu par mes malheurs. Ordonnez de mon sort, je suis soumis à vos ordres, mais si vous m'ordonnez de partir dans l'état où je suis, obéir m'est impossible et de plus je ne saurais où fuir. » Daignez, milord agré, les assurances de mon profond respect. Au roi de Prusse, à moitié travers vers le 11 juillet 1762. J'ai dit beaucoup de mal de vous, j'en dirai peut-être encore. Cependant, chassé de France, de Genève, du canton de Berne, je viens chercher un asile dans vos États. Ma faute est peut-être de n'avoir pas commencé par là cet éloge est de ceux dont vous êtes digne. Sire, je n'ai mérité de vous aucune grâce et je n'en demande pas, mais j'ai cru devoir déclarer à votre majesté que j'étais en son pouvoir et que j'y voulais être. Elle peut disposer de moi comme il lui plaira. Au roi de Prusse, Frédéric II, à moitié travers, le 1er novembre 1762. Sire, vous êtes mon protecteur et mon bienfaiteur, et je porte un cœur fait pour la reconnaissance. Je veux m'acquitter avec vous si je puis. Vous voulez me donner du pain. N'y a-t-il aucun de vos sujets qui en manque ôtez de devant mes yeux cette épée qui m'éblouit et me blesse. Elle n'a que trop bien fait son service, et le sceptre est abandonné. La carrière des rois de votre étoffe est grande. Vous êtes encore loin du terme. Cependant le temps presse et il ne vous reste pas un moment à perdre pour y arriver. Sondez bien votre cœur, ô oh, Frédéric, pourriez-vous vous résoudre à mourir sans avoir été le plus grand des hommes Puissé-je voir Frédéric le juste et le redouté couvrir enfin ses états d'un peuple heureux dont il soit le père, et Jean-Jacques Rousseau, l'ennemi des rois, ira mourir de joie au pied de son trône que votre majesté, sire, daigne agréer mon zèle et mon très profond respect. À Mademoiselle Duchesne, sœur de l'Hôtel-Dieu de Montmorency, Mottier, janvier 1763. Non, mademoiselle, on n'oublie ici ni votre amitié ni vos services. Et si Mademoiselle Levasseur ne vous a pas remboursé plus tôt les deux louis que vous avez eu la bonté de lui prêter, c'est que sa mère, qui les a reçus, lui avait promis et lui a encore fait écrire qu'elle vous les rendrait. Elle n'en a rien fait. Cela n'est pas étonnant. Ils sont passés avec le reste. Assurément, si cette femme a mangé tout l'argent qu'elle a tiré de sa fille et de moi depuis vingt ans, il faut qu'elle ait un terrible avaloir. Si vous pouvez, Mademoiselle, attendre sans vous gêner jusqu'à Pâques, cet argent vous sera remboursé à Montmorency. Sinon, prenez la peine, quand vous irez à Paris, de passer à l'hôtel de Luxembourg, et en montrant cette lettre à Monsieur de la Roche, que d'ailleurs j'aurai soin de prévenir, il vous remettra ces deux louis pour lesquels Mademoiselle Levasseur vous fait ses tendres remerciements, ainsi que pour toutes les bontés dont vous l'avez honoré. À l'égard de la Dame Mingot, il est très sûr qu'il ne lui est rien dû. J'en ai pour preuve, premièrement, la probité de Mademoiselle Levasseur, bien incapable assurément de nier une dette la somme qu'elle demande qui passe ce que j'ai pu acheter de volaille durant tout mon séjour à Montmorency mon usage constant de tout payer comptant à mesure que j'achetais le fait particulier de quatre poulettes qu'acheta Mademoiselle Levasseur pour avoir des œufs durant le carême et qu'elle paya comptant au garçon de la dite Mingo et en présence de la mère Nanon. Passé laquelle emplette il n'est pas entré une pièce de volaille dans ma maison. Enfin, l'exactitude même de la dame Mingo à se faire payer puisque ma retraite fit trop de bruit pour être ignorée d'elle et qu'il n'est pas apparent que venant tous les mercredis au marché, elle ne se fut pas avisée de venir chez moi demander son dû. C'est pour payer les bagatelles que je pouvais devoir que Mlle Levasseur est restée après moi. Pourquoi ne s'est-elle pas adressée à elle Donner à la dame main gauche ce qu'elle demande serait récompenser la friponnerie. Ce n'est assurément pas mon avis. Je regrette beaucoup le bon M. Matas et je crois qu'il sera regretté dans tout le pays. Il faut espérer que M. Dumoulin le remplacera à tous égards et n'héritera pas moins de sa bonté que de son bien. Je savais que Madame de Verdelin avait fait inoculer ces demoiselles, mais je suis en peine d'elle-même, n'ayant pas de ces nouvelles depuis longtemps, quoique je lui ai écrit le dernier. Comme il faut nécessairement affranchir les lettres, les domestiques ne sont pas toujours exacts là-dessus, et ils s'en perdent beaucoup de cette manière. Si elle vient ce printemps à Soisy, je vous prie de lui parler de moi. C'est une bonne et aimable dame dont l'amitié m'était bien chère, et dont je regretterai toute ma vie de voisinage. Je suis très sensible, mademoiselle, au souvenir de toute votre famille. Je vous prie de lui en marquer ma reconnaissance et d'y faire à tout le monde mes salutations, de même qu'à tous les honnêtes gens de Montmorency qui vous paraîtront avoir conservé quelque amitié pour moi. Mais respect en particulier à monsieur le curé, si vous en trouvez l'occasion. Recevez ceux de mademoiselle Levasseur et les assurances de son éternel attachement. Croyez aussi, je vous supplie, que je conserverai toute ma vie les sentiments de respect, d'estime et d'amitié que je vous ai voués. Euh, monsieur le maréchal de Luxembourg, motier le 20 janvier 1763. Vous voulez, monsieur le maréchal, que je vous décrive le pays que j'habite. Mais comment faire je ne sais voir qu'autant que je suis ému. Les objets indifférents sont nuls à mes yeux, je n'ai de l'attention qu'à proportion de l'intérêt qu'ils excitent, et quel intérêt puis-je prendre à ce que je retrouve si loin de vous Des arbres, des rochers, des maisons, des hommes même sont autant d'objets isolés dont chacun en particulier donne peu d'émotion à celui qui le regarde. Mais l'impression commune de tout cela, qui le réunit en un seul tableau, dépend de l'état où nous sommes en le contemplant. Ce tableau, quoique toujours le même, se peint d'autant de manières qu'il y a de dispositions différentes dans les cœurs des spectateurs, et ces différences qui font celles de nos jugements n'ont pas lieu seulement d'un spectateur à l'autre, mais dans le même en différents temps. C'est ce que j'éprouve bien sensiblement en voyant ce pays que j'ai tant aimé. J'y croyais retrouver ce qui m'avait charmé dans ma jeunesse. Tout est changé. C'est un autre paysage, un autre air, un autre ciel, d'autres hommes. Et ne voyant plus mes montagnons avec des yeux de vingt ans, je les trouve beaucoup vieillis. On regrette le bon temps d'autrefois, je le crois bien. Nous attribuons aux choses tout le changement qui s'est fait en nous, et lorsque le plaisir nous quitte, nous croyons qu'il n'est plus nulle part. D'autres voient les choses comme nous les avons vues, et les verront comme nous les voyons aujourd'hui. Mais ce sont des descriptions que vous me demandez, non des réflexions, et les miennes m'entraînent comme un vieux enfant qui regrette encore ses anciens jeux. Les diverses impressions que ce pays a faites sur moi, à différents âges, me font conclure que nos relations se rapportent toujours plus à nous qu'aux choses, et que, comme nous décrivons bien plus ce que nous sentons que ce qui est, il faudrait savoir comment était affecté l'auteur d'un voyage en l'écrivant pour juger de combien ses peintures sont au deçà ou au delà du vrai. Sur ce principe, ne vous étonnez pas de voir devenir aride et froid sous ma plume un pays jadis si verdoyant, si vivant, si riant à mon gré. Vous sentirez trop aisément dans ma lettre en quel temps de ma vie et en quelle saison de l'année elle a été écrite. Je sais, monsieur le maréchal, que pour vous parler d'un village, il ne faut pas commencer par vous décrire toute la Suisse, comme si le petit coin que j'habite avait besoin d'être circonscrit d'un si grand espace. Et il y a pourtant des choses générales qui ne se devinent point, et qu'il faut savoir pour juger les objets particuliers. Pour connaître Mautier, il faut avoir quelque idée du comté de Neuchâtel, et pour connaître le comté de Neuchâtel, il faut en avoir de la Suisse entière. Elle offre à peu près partout les mêmes aspects, des lacs, des prés, des bois, des montagnes. Et les Suisses sont aussi tous à peu près les mêmes mœurs, mêlées de l'imitation des autres peuples et de leur antique simplicité. Ils ont des manières de vivre qui ne changent point, parce qu'elles tiennent pour ainsi dire au sol, au climat, aux besoins divers, et qu'en cela les habitants sont toujours forcés de se conformer à ce que la nature des lieux leur prescrit. Telle est par exemple la distribution de leurs habitations, beaucoup moins réunies en villes et en bourgs qu'en France, mais éparses et dispersées çà et là sur le terrain avec beaucoup plus d'égalité. Ainsi, quoique la Suisse soit en général plus peuplée à proportion que la France, elle a de moins grandes villes et de moins gros villages. En revanche, on y trouve partout des maisons. Le village couvre toute la paroisse et la ville s'étend sur tout le pays. La Suisse entière est comme une grande ville divisée en treize quartiers dont les uns sont sur les vallées, d'autres sur les coteaux, d'autres sur les montagnes. Genève, Saint-Gall, Neuchâtel sont comme les faubourgs. Il y a des quartiers plus ou moins peuplés, mais tous le sont assez pour marquer qu'on est toujours dans la ville. Seulement les maisons, au lieu d'être alignées, sont dispersées sans symétrie et sans ordre, comme on dit qu'elles étaient de l'ancienne Rome. On ne croit plus parcourir des déserts quand on trouve des clochers parmi les sapins, des troupeaux sur des rochers, des manufactures dans des précipices, des ateliers sur des torrents. Ce mélange bizarre a je ne sais quoi d'animé, de vivant, qui respire la liberté, le bien-être, et qui fera toujours du pays où il se trouve un spectacle unique en son genre, mais fait seulement pour des yeux qui sachent voir. Cette égale distribution vient du grand nombre de petits États qui divisent les capitales, de la rudesse du pays qui rend les transports difficiles, et de la nature des productions, qui, consistant pour la plupart en pâturage, exige que la consommation s'en fasse sur les lieux mêmes, et tient les hommes aussi dispersés que les bestiaux. Voilà le plus grand avantage de la Suisse, avantage que ses habitants regardent peut-être comme un malheur, mais qu'elle tient d'elle seule, que rien ne peut lui ôter, qui, malgré eux, contient ou retarde le progrès du luxe et des mauvaises mœurs, et qui réparera toujours à la longue l'étonnante déperdition d'hommes qu'elle fait dans les pays étrangers. Voilà le bien. Voici le mal amené par ce bien même. Quand les Suisses, qui jadis vivant renfermés dans leurs montagnes se suffisaient à eux-mêmes, ont commencé à communiquer avec d'autres nations, ils ont pris goût à leur manière de vivre et ont voulu l'imiter. Ils se sont aperçus que l'argent était une bonne chose et ils ont voulu en avoir. Sans production et sans industrie pour l'attirer, ils se sont mis en commerce eux-mêmes, ils se sont vendus en détail aux puissances. Ils ont acquis par là précisément assez d'argent pour sentir qu'ils étaient pauvres. Les moyens de le faire circuler étant presque impossibles dans un pays qui ne produit rien et qui n'est pas maritime, cet argent leur a apporté de nouveaux besoins sans augmenter leurs ressources. Ainsi leurs premières aliénations de troupes les ont forcées d'en faire de plus grandes et de continuer toujours. La vie étant devenue plus dévorante, le même pays n'a plus pu nourrir la même quantité d'habitants. C'est la raison de la dépopulation qu'on commence à sentir dans toute la Suisse. Elle nourrissait ses nombreux habitants quand ils ne sortaient pas de chez eux. À présent qu'il en sort la moitié, à peine peut-elle nourrir l'autre. Le pi est que de cette moitié qui sort, il en rentre assez pour corrompre tout ce qui reste par l'imitation des usages des autres pays, et surtout de la France, qui a plus de troupes suisses qu'aucune autre nation. Je dis corrompre sans entrer dans la question si les mœurs françaises sont bonnes ou mauvaises en France, parce que cette question est hors de doute quant à la Suisse, et qu'il n'est pas possible que les mêmes usages conviennent à des peuples qui, n'ayant pas les mêmes ressources et n'habitant ni le même climat ni le même sol, seront toujours forcés de vivre différemment. Le concours de ces deux causes, l'une bonne et l'autre mauvaise, se fait sentir en toutes choses. Il rend raison de tout ce qu'on remarque de particulier dans les mœurs des Suisses, et surtout de ce contraste bizarre de recherche et de simplicité qu'on sent dans toutes leurs manières. Il tourne à contresens tous les usages qu'ils prennent, non par faute d'esprit, mais par la force des choses. En transportant dans leur bois les usages des grandes villes, ils les appliquent de la façon la plus comique. Ils ne savent ce que c'est qu'habits de campagne. Ils sont parés dans leurs rochers comme ils l'étaient à Paris. Ils portent sous leurs sapins tous les pompons du palais royal. Et j'en ai vu revenir de faire leur foin en petite veste à falbala de mousseline. Leur délicatesse a toujours quelque chose de grossier. Leur luxe a toujours quelque chose de rude. Ils ont des entremets, mais ils mangent du pain noir. Ils servent des vins étrangers et boivent de la piquette. Des ragoûts fins accompagnent leurs rances et leurs choux. Ils vous offriront à déjeuner du café, du fromage, à goûter du thé avec du jambon. Les femmes ont de la dentelle et de fort gros linge, des robes de goût avec des bas de couleur. Leurs valets, alternativement laquais et bouvier, ont l'habit de livrer en servant à table et mêlent l'odeur du fumier à celle des mets. Comme on ne jouit du luxe qu'en le montrant, il a rendu leur société plus familière sans leur ôter pourtant le goût de leurs demeures isolées. Personne ici n'est surpris de me voir passer l'hiver en campagne. Mille gens du monde en font tout autant. On demeure donc toujours séparés, mais on se rapproche par de longues et fréquentes visites. Pour étaler sa parure et ses meubles, il faut attirer ses voisins et les aller voir. Et comme ses voisins sont souvent éloignés, ce sont des voyages continuels. Aussi, jamais n'ai je vu de peuple si allant que les Suisses, les Français n'en approchent pas. Vous ne rencontrez de toutes parts que voitures, il n'y a pas une maison qui n'ait la sienne, et les chevaux dont la Suisse abonde ne sont rien moins qu'inutiles dans le pays. Mais comme ces courses sont souvent pour objet des visites de femmes, quand on monte à cheval, ce qui commence à devenir rare, on y monte en joli bas blanc bien tiré, et l'on fait à peu près pour courir la poste, la même toilette que pour aller au bal. Aussi, rien n'est si brillant que les chemins de la Suisse. On y rencontre à tout moment de petits messieurs et de belles dames. On n'y voit que bleu, vert, couleur de rose. On se croirait au jardin du Luxembourg. Un effet de ce commerce est d'avoir presque ôté aux hommes le goût du vin. Et un effet contraire de cette vie ambulante est d'avoir cependant rendu les cabarets fréquents et bons dans toute la Suisse. Je ne sais pas pourquoi l'on vante tant ceux de France. Il n'approche sûrement pas de ceux-ci. Il est vrai qu'il y fait très cher vivre, mais cela est vrai aussi de la vie domestique et cela ne saurait être autrement dans un pays qui produit peu de denrées et où l'argent ne laisse pas de circuler. Les trois seules marchandises qui leur en est fournies jusqu'ici sont les fromages, les chevaux et les hommes. Mais depuis l'introduction du luxe, ce commerce ne leur suffit plus, et ils y ont ajouté celui des manufactures dont ils sont redevables aux réfugiés français. Ressources qui cependant a plus d'apparence que de réalité, car comme la cherté des denrées augmente avec les espèces et que la culture de la terre se néglige quand on gagne davantage à d'autres travaux, avec plus d'argent, ils n'en sont pas plus riches. Ce qui se voit par la comparaison avec les Suisses catholiques qui, n'ayant pas la même ressource, sont plus pauvres d'argent et ne vivent pas moins bien. Il est fort singulier qu'un pays si rude et dont les habitants sont si enclins à sortir leur inspire pourtant un amour si tendre que le regret de l'avoir quitté les y ramène presque tous à la fin, et que ce regret donne à ceux qui n'y peuvent revenir une maladie quelquefois mortelle qu'ils appellent, je crois, le Hemweh. Il y a dans la Suisse un air célèbre appelé le Rans des Vaches, que les bergers sonnent sur leurs cornets et dont il faut retentir tous les coteaux du pays. Cette terre, qui est peu de choses en lui même, mais qui rappelle aux Suisses mille idées relatives au pays natal, leur fait verser des torrents de larmes quand ils l'entendent en terre étrangère. Il en a même fait mourir de douleur un si grand nombre qu'il a été défendu par ordonnance du roi de jouer le Rans des vaches dans les troupes suisses. Mais, monsieur le maréchal, vous savez peut être tout cela mieux que moi, et les réflexions que ce fait présente ne vous auront pas échappé. « Je ne puis m'empêcher de remarquer seulement que la France est assurément le meilleur pays du monde, où toutes les commodités et tous les agréments de la vie concourent au bien-être des habitants. Cependant, il n'y a jamais eu, que je sache, de M.V. ni de Rans des Vaches qui fit pleurer et mourir de regret un Français en pays étranger, et cette maladie diminue beaucoup chez les Suisses depuis qu'on vit plus agréablement dans leur pays. » Les Suisses en général sont justes, officieux, charitables, amis solides, braves soldats et bons citoyens, mais intrigants, défiants, jaloux, curieux, avares. Et leur avarice contient plus leur luxe que ne fait leur simplicité. Ils sont ordinairement graves et flegmatiques, mais ils sont furieux dans la colère, et leur joie est une ivresse. Je n'ai rien vu de si gai que leur jeu. Il est étonnant que le peuple français danse tristement, languissamment, de mauvaise grâce, et que les danses suisses soient sautillantes et vives. Les hommes y montrent leur vigueur naturelle, et les filles y ont une légèreté charmante. On dirait que la terre leur brûle les pieds. Les Suisses sont adroits et rusés dans les affaires. Les Français qui les jugent grossiers sont bien moins déliés qu'eux. Ils jugent de leur esprit par leur accent la cour de france a toujours voulu leur envoyer des gens fins et s'est toujours trompée à ce genre d'escrime ils battent communément les français mais envoyez leur des gens droits et fermes vous ferez d'eux ce que vous voudrez car naturellement ils vous aiment le marquis de bonnac qui avait tant d'esprit mais qui passait pour adroit n'a rien fait en suisse et jadis le maréchal de bassompierre y faisait tout ce qu'il voulait parce qu'il était franc ou qu'il passait chez eux pour l'être les Suisses négocieront toujours avec avantage, à moins qu'ils ne soient vendus par leurs magistrats, attendu qu'ils peuvent mieux se passer d'argent que les puissances ne peuvent se passer d'hommes. Car, pour votre blé, quand ils voudront, ils n'en auront pas besoin. Et il faut avouer que s'ils font bien leur traité, ils les exécutent encore mieux. Fidélité qu'on ne se pique pas de leur rendre. Je ne vous dirai rien, monsieur le maréchal, de leur gouvernement et de leur politique, parce que cela me mènerait trop loin, et que je ne veux vous parler que de ce que j'ai vu. Quant au comté de Neuchâtel où j'habite, vous savez qu'il appartient au roi de Prusse. Cette petite principauté, après avoir été démembrée du royaume de Bourgogne et passée successivement dans les maisons de Chalon, d'Orberg et de Longueville, tomba enfin en 1707 dans celle des Brandebourgs par la décision des États du pays, juge naturel des droits des prétendants. Je n'entrerai point dans l'examen des raisons sur lesquelles le roi de Prusse fut préféré au prince de Conti, ni des influences que purent avoir d'autres puissances dans cette affaire. Je me contenterai de remarquer que, dans la concurrence entre ces deux princes, c'était un honneur qui ne pouvait manquer aux Neuchâtelois d'appartenir un jour à un grand capitaine. Au reste, ils ont conservé sous leur souverain à peu près la même liberté qu'ont les autres Suisses. Mais peut-être en sont-ils plus redouvables à leur position qu'à leur habileté, car je les retrouve bien remuants pour des gens sages. Tout ce que je viens de remarquer des Suisses en général caractérise encore plus fortement ce peuple-ci, et le contraste du naturel et de l'imitation s'y fait encore mieux sentir, avec cette différence pourtant que le naturel a moins d'étoffe, et qu'à quelques petits coins près, la dorure couvre tout le fond. Le pays, si l'on excepte la ville et les bords du lac, est aussi rude que le reste de la Suisse. La vie y est aussi rustique, et les habitants, accoutumés à vivre sous des princes, s'y sont encore plus affectionnés aux grandes manières, de sorte qu'on trouve ici du jargon, des airs, dans tous les états, de beaux parleurs labourant leurs champs et des courtisans en souquenille. Ainsi appelle-t-on les Neuchâtelois les gascons de la Suisse. Ils ont de l'esprit et ils se piquent de vivacité. Ils lisent et la lecture leur profite. Les paysans même sont instruits. Ils ont presque tous un petit recueil de livres choisis qu'ils appellent leur bibliothèque. Ils sont même assez au courant pour les nouveautés. Il faut valoir tout cela dans la conversation d'une manière qui n'est point gauche et ils ont presque le ton du jour comme s'ils vivaient à Paris. Il y a quelque temps, qu'en me promenant, je m'arrêtai devant une maison où des filles faisaient de la dentelle. La mère berçait un petit enfant, et je la regardais faire, quand je vis sortir de la cabane un gros paysan qui, m'abordant d'un air aisé, me dit Vous voyez qu'on ne suit pas trop bien vos préceptes, mais nos femmes tiennent autant aux vieux préjugés qu'elles aiment les nouvelles modes. Je tombai des nues. J'ai entendu parmi ces gens-là cent propos du même ton. Beaucoup d'esprit et encore plus de prétention, mais sans aucun goût. Voilà ce qui m'a d'abord frappé chez les Neuchâtelois. Ils parlent très bien, très aisément, mais ils écrivent platement et mal. Surtout quand ils veulent écrire légèrement, et ils le veulent toujours. Comme ils ne savent pas même en quoi consiste la grâce et le sel du style léger, lorsqu'ils ont enfilé des phrases lourdement sémillantes, ils se croient autant de Voltaire et de Crébillon. Ils ont une manière de journal dans lequel ils s'efforcent d'être gentils et badins. Ils y fourrent même de petits verres de leur façon. Madame la maréchale trouverait, sinon de l'amusement, au moins de l'occupation dans ce mercure, car c'est d'un bout à l'autre un logogriffe qui demande un meilleur Oedipe que moi. C'est à peu près le même habillement que dans le canton de Berne, mais un peu plus contourné. Les hommes se mettent assez à la française, et c'est ce que les femmes voudraient bien faire aussi. Mais comme elles ne voyagent guère, ne prenant pas comme eux les modes de la première main, elles les outrent, les défigurent, et, chargées de prétentailles et de falbalas, elles semblent parées de guenilles. Quant à leur caractère, il est difficile d'en juger tant il est offusqué de manière. Ils se croient polis parce qu'ils sont façonniers et gais parce qu'ils sont turbulents. Je crois qu'il n'y a que les Chinois au monde qui puissent l'emporter sur eux à faire des compliments. Arrivez-vous fatigués, pressés, n'importe, il faut d'abord prêter le flanc à la longue bordée. Tant que la machine est montée, elle joue et elle se remonte toujours à chaque arrivant. La politesse française est de mettre les gens à leur aise et même de s'y mettre aussi. La politesse neuchâteloise est de gêner et soi-même et les autres. Ils ne consultent jamais ce qui vous convient, mais ce qui peut étaler leur prétendu savoir vivre. Leurs offres exagérées ne tentent point elles ont toujours je ne sais quel air de formule, je ne sais quoi de sec et d'apprêté qui vous invite au refus. Ils sont pourtant obligeants, officieux, hospitaliers très réellement, surtout pour les gens de qualité. On est toujours sûr d'être accueilli d'eux en se donnant pour marquis ou comte. Et comme une ressource aussi facile ne manque pas aux aventuriers, ils en ont souvent dans leur ville qui pour l'ordinaire y sont très fêtés. Un simple honnête homme avec des malheurs et des vertus ne le serait pas de même. On peut y porter un grand nom sans mérite, mais non pas un grand mérite sans nom. Du reste, ceux qu'ils servent une fois, ils les servent bien, ils sont fidèles à leurs promesses, et n'abandonnent pas aisément leurs protégés. Il se peut même qu'ils soient aimants et sensibles, mais rien n'est plus éloigné du ton du sentiment que celui qu'ils prennent. Tout ce qu'ils font par humanité semble être fait par ostentation, et leur vanité cache leur bon cœur. Cette vanité est leur vice dominant. Elle perce partout et d'autant plus aisément qu'elle est maladroite. Ils se croient tous gentilshommes, quoique leurs souverains ne fussent que des gentilshommes eux-mêmes. Ils aiment la chasse, moins par goût que parce que c'est un amusement noble. Enfin, jamais on ne vit des bourgeois si pleins de leur naissance. Ils ne la vantent pourtant pas, mais on voit qu'ils s'en occupent. Ils n'en sont pas fiers, ils n'en sont qu'entêtés. Au défaut de dignités et de titres de noblesse, ils ont des titres militaires ou municipaux en telle abondance qu'il y a plus de gens titrés que de gens qui ne le sont pas. C'est monsieur le colonel, monsieur le major, monsieur le capitaine, monsieur le lieutenant, monsieur le conseiller, monsieur le châtelain, monsieur le maire, monsieur le justicier, monsieur le professeur, monsieur le docteur, monsieur l'ancien. Si j'avais pu reprendre ici mon ancien métier, je ne doute pas que je n'y fusse monsieur le copiste. Les femmes portent aussi les titres de leurs maris. Madame la conseillère, Madame la ministre. J'ai pour voisin Madame la major. Et comme on n'y nomme les gens que par leurs titres, on est embarrassé. Comment dire aux gens qui n'ont que leur noms? C'est comme s'ils n'en avaient point. Le sexe n'y est pas beau. On dit qu'il a dégénéré. Les filles ont beaucoup de liberté et en font usage. Elles se rassemblent souvent en société, où l'on joue, où l'on goûte, où l'on babille, et où l'on attire tant qu'on peut les jeunes gens. Mais par malheur ils sont rares, et il faut se les arracher. Les femmes vivent assez sagement. Il y a dans le pays d'assez bons ménages, et il y en aurait bien davantage si c'était un air de bien vivre avec son mari du reste vivant beaucoup en campagne lisant moins et avec moins de fruits que les hommes elles n'ont pas l'esprit fort orné et dans le désœuvrement de leur vie elles n'ont d'autre ressource que de faire de la dentelle d'épier curieusement les affaires des autres de médire et de jouer il y en a pourtant de fort aimables mais en général on ne trouve pas dans leur entretien ce ton que la décence et l'honnêteté même rendent séducteur, ce ton que les Françaises savent si bien prendre quand elles veulent, qui montre du sentiment, de l'âme, et qui promet des héroïnes de romans. La conversation des Neuchâteloises est aride ou badine. Elle tarit sitôt qu'on ne plaisante pas. Les deux sexes ne manquent pas de bon naturel, et je crois que ce n'est pas un peuple sans mœurs, mais c'est un peuple sans principe, et le mot de vertu y est aussi étranger ou aussi ridicule qu'en Italie. La religion dont ils se piquent sert plutôt à les rendre hargneux que bons. Guidés par leur clergé, ils épilogueront sur le dogme, mais pour la morale, ils ne savent ce que c'est. Car, quoi qu'ils parlent beaucoup de charité, celle qu'ils ont n'est assurément pas l'amour du prochain, c'est seulement l'affectation de donner l'aumône. Un chrétien pour eux est un homme qui va au prêche tous les dimanches, quoi qu'il fasse en intervalle, il n'importe pas. Leurs ministres, qui se sont acquis un grand crédit sur le peuple tandis que leurs princes étaient catholiques, voudraient conserver ce crédit en se mêlant de tout, en chicanant sur tout, en étendant à tout la juridiction de l'Église. Ils ne voient pas que leur temps est passé. Cependant, ils viennent encore d'exciter dans l'État une fermentation qui achèvera de les perdre. L'importante affaire dont il s'agissait était de savoir si les peines des damnés étaient éternelles. Vous auriez peine à croire avec quelle chaleur cette dispute a été agitée. Celle du jansénisme en France n'en a pas approché. Tous les corps assemblés, les peuples prêts à prendre les armes, ministres destitués, magistrats interdits, tout marquait les approches d'une guerre civile. Et cette affaire n'est pas tellement finie qu'elle ne puisse laisser de longs souvenirs. Quand ils se seraient tous arrangés pour aller en enfer, ils n'auraient pas plus de soucis de ce qui s'y passe. Voilà les principales remarques que j'ai faites jusqu'ici sur les gens du pays où je suis. Elles vous paraîtraient peut-être un peu dures pour un homme qui parle de ses hôtes si je vous laissais ignorer que je ne leur suis redevable d'aucune hospitalité. Ce n'est point à messieurs de Neuchâtel que je suis venu demander un asile qu'il ne m'aurait sûrement pas accordé, c'est à milord de maréchal, et je ne suis ici que chez le roi de Prusse. Au contraire, à mon arrivée sur les terres de la principauté, le magistrat de la ville de Neuchâtel s'est pour tout accueil dépêché de défendre mon livre sans le connaître. La classe des ministres l'a déféré de même au Conseil d'État, et on n'a jamais vu de gens plus pressés d'imiter les sottises de leurs voisins. Sans la protection déclarée de Milord Maréchal, on ne m'eût sûrement point laissé en paix dans ce village. Tant de bandits se réfugient dans le pays que ceux qui le gouvernent ne savent pas distinguer des malfaiteurs poursuivis, les innocents opprimés, ou se mettent peu en peine d'en faire la différence. La maison que j'habite appartient à une nièce de mon vieux ami M. Roguin. Ainsi, loin d'avoir nulle obligation à Messieurs de Neuchâtel, je n'ai qu'à m'en plaindre. D'ailleurs, je n'ai pas mis le pied dans leur ville. Ils me sont étrangers à tous égards. Je ne leur dois que justice en parlant d'eux, et je la leur rends. Je la rends de meilleur cœur encore à ceux d'entre eux qui m'ont comblé de caresses, d'offres, de politesses de toute espèce. Flatté de leur estime et touché de leur bonté, je me ferai toujours un devoir et un plaisir de leur remarquer mon attachement et ma reconnaissance. Mais l'accueil qu'ils m'ont fait n'a rien de commun avec le gouvernement de qui m'en eût fait un bien différent s'il en eût été le maître. Je dois dire encore que si la mauvaise volonté du corps des ministres n'est douteuse, j'ai beaucoup à me louer en particulier de celui dont j'habite la paroisse. Il me vint voir à mon arrivée, il me fit mille offres de services qui n'étaient point vaines, comme il me l'a prouvé dans une occasion essentielle où il s'est exposé à la mauvaise humeur de plus d'un de ses confrères pour s'être montré vrai pasteur envers moi. Je m'attendais d'autant moins de sa part à cette justice qu'il avait joué dans les précédentes brouilleries un rôle qui n'annonçait pas un ministre tolérant. C'est au surplus un homme assez gai dans la société, qui ne manque pas d'esprit, qui fait quelquefois d'assez bons sermons et souvent de fort bons contes. Je m'aperçois que cette lettre est un livre et je n'en suis encore qu'à la moitié de ma relation. Je vais, monsieur le maréchal, vous laisser reprendre à... A à monsieur le maréchal de Luxembourg, moitié le 28 janvier 1763. Il faut, monsieur le maréchal, avoir du courage pour décrire en cette saison le lieu que j'habite. Des cascades, des glaces, des rochers nus, des sapins noirs couverts de neige sont les objets dont je suis entouré. Et à l'image de l'hiver, le pays, ajoutant l'aspect de l'aridité, ne promet à le voir qu'une description fort triste. Aussi a-t-il l'air assez nu en toute saison. Mais il est presque effrayant dans celle-ci. Il faut donc vous le représenter comme je l'ai trouvé en y arrivant et non comme je le vois aujourd'hui, sans quoi l'intérêt que vous prenez à moi m'empêcherait de vous en rien dire. Figurez-vous donc un vallon d'une bonne demi-lieue de large et d'environ deux lieues de long, au milieu duquel passe une petite rivière appelée l'Areuse, dans la direction du nord-ouest au sud-est. Ce vallon, formé par deux chaînes de montagnes qui sont des branches du mont Jura et qui se resserrent par les deux bouts, reste pourtant assez ouvert pour laisser voir au loin ses prolongements, lesquels, divisés en rameaux par les bras des montagnes, offrent plusieurs belles perspectives. Ce vallon, appelé le Val de travers, du nom d'un village qui est à son extrémité orientale, est garni de quatre ou cinq autres villages à peu de distance les uns des autres, celui de Motier qui forme le milieu est dominé par un vieux château désert, dont le voisinage et la situation solitaire et sauvage m'attirent souvent dans mes promenades du matin, d'autant plus que je puis sortir de ce côté par une porte de derrière sans passer par la rue ni devant aucune maison. On dit que les bois et les rochers qui environnent ce château sont fort remplis de vipères, cependant ayant beaucoup parcouru tous les environs et m'étant assis à toutes sortes de places, je n'en ai point vu jusqu'ici. Outre ces villages, on voit vers le bas des montagnes plusieurs maisons éparses qu'on appelle des prises, dans lesquelles on tient des bestiaux et dont plusieurs sont habités par les propriétaires, la plupart paysans. Il y en a une, entre autres, à mi-côté nord, par conséquent exposée au midi, sur une terrasse naturelle, dans la plus admirable position que j'ai jamais vue, et dont le difficile accès m'eût rendu l'habitation très commode. J'en fus si tenté que, dès la première fois, je m'étais presque arrangé avec le propriétaire pour y loger. Mais on m'a dit tant de mal de cet homme, qu'aimant encore mieux la paix et la sûreté qu'une demeure agréable, j'ai pris le parti de rester où je suis. La maison que j'occupe est dans une moins belle position, mais elle est grande, assez commode. Elle a une galerie extérieure où je me promène dans les mauvais temps, et ce qui vaut mieux que tout le reste, c'est un asile offert par l'amitié. On la voit sortir tout d'un coup de terre à sa source, non point en petite fontaine ou ruisseau, mais toute grande et déjà rivière, comme la fontaine de Vaucluse, en bouillonnant à travers les rochers. Comme cette source est fort enfoncée dans les rochers escarpés d'une montagne, on y est toujours à l'ombre. Et la fraîcheur continuelle, le bruit, les chutes, le cours de l'eau, m'attirant l'été à travers ces roches brûlantes, me font souvent mettre en nage pour aller chercher le frais près de ce murmure, ou plutôt près de ce fracas, plus flatteur à mon oreille que celui de la rue Saint-Martin. L'élévation des montagnes qui forment le vallon n'est pas excessive, mais le vallon même est montagne, étant fort élevé au dessus du lac, et le lac ainsi que le sol de toute la Suisse est encore extrêmement élevé sur les pays des plaines, élevés à leur tour au dessus du niveau de la mer. On peut juger sensiblement de la pente totale par le long et rapide cours des rivières qui, des montagnes de la Suisse, vont se rendre les unes dans la Méditerranée et les autres dans l'océan. Ainsi, quoique la ruse traversant le vallon soit sujette à de fréquents débordements qui font des bords de son lit une espèce de marais, on n'y sent point le marécage. L'air n'y est point humide et malsain, la vivacité qu'il tire de son élévation l'empêchant de rester longtemps chargé de vapeurs grossières. Et les brouillards, assez fréquents les matins, cèdent pour l'ordinaire à l'action du soleil à mesure qu'il s'élève. Comme entre les montagnes et les vallées, la vue est toujours réciproque, celle dont je jouis ici dans un fond n'est pas moins vaste que celle que j'avais sur les hauteurs de Montmorency, mais elle est d'un autre genre. Elle ne flatte pas, elle frappe, elle est plus sauvage que riante. L'art n'y étale pas ses beautés, mais la majesté de la nature en impose, et quoique le parc de Versailles soit plus grand que ce vallon, il ne paraîtrait qu'un colifichet en sortant d'ici. Au premier coup d'œil, le spectacle tout grand qu'il est semble un peu nu. On voit très peu d'arbres dans la vallée, ils y viennent mal et ne donnent presque aucun fruit. L'escarpement des montagnes étant très rapide, montre en divers endroits le gris des rochers. Le noir des sapins coupe ce gris d'une nuance qui n'est pas riante, et ces sapins, si grands, si beaux quand on est dessous, ne paraissent au loin que des arbrisseaux, ne promettent ni l'asile ni l'ombre qu'ils donnent. Le fond du vallon, presque au niveau de la rivière, semble n'offrir à ses deux bords qu'un large marais où l'on ne saurait marcher. La réverbération des rochers n'annonce pas dans un lieu sans arbres une promenade bien fraîche quand le soleil lui, sitôt qu'il se couche, il laisse à peine un crépuscule, et la hauteur des monts interceptant toute la lumière fait passer presque à l'instant du jour à la nuit. Mais si la première impression de tout cela n'est pas agréable, elle change insensiblement par un examen plus détaillé. Et dans un pays où l'on croyait avoir tout vu du premier coup d'œil, on se trouve avec surprise environné d'objets chaque jour plus intéressants. Si la promenade de la vallée est un peu uniforme, elle est en revanche extrêmement commode. Tout y est du niveau le plus parfait. Les chemins y sont unis comme des allées de jardin. Les bords de la rivière offrent par place de larges pelouses d'un plus beau vert que les gazons du palais royal. Et l'on s'y promène avec délice le long de cette belle eau qui, dans le vallon, prend un cours paisible en quittant ses cailloux et ses rochers qu'elle retrouve au sortir du val de travers. On a proposé de planter ces bords de saules et de peupliers pour donner durant la chaleur du jour de l'ombre au bétail désolé par les mouches. Si jamais ce projet s'exécute, les bords de la Reuse deviendront aussi charmants que ceux du lignon et il ne leur manquera plus que des astrés, des sylvandres et un durfait. Comme la direction du vallon coupe obliquement le cours du soleil, la hauteur des monts jette toujours de l'ombre par quelque côté sur la plaine, de sorte qu'en dirigeant ses promenades et choisissant ses heures, on peut aisément faire à l'abri du soleil tout le tour du vallon. D'ailleurs, ces mêmes montagnes interceptant ses rayons, font qu'il se lève tard et se couche de bonne heure, en sorte qu'on n'en ait pas longtemps brûlé. Nous avons presque ici la clé de l'énigme du ciel de trois aulnes, et il est certain que les maisons qui sont près de la source de la Reuse n'ont pas trois heures de soleil même en été. Lorsqu'on quitte le bas du vallon pour se promener à mi-côte, comme nous fîmes une fois à monsieur le maréchal le long des champeaux du côté d'Andilly, on n'a pas une promenade aussi commode. Mais cet agrément est bien compensé par la variété des sites et des points de vue, par les découvertes que l'on fait sans cesse autour de soi, par les jolis réduits qu'on trouve dans les gorges des montagnes, où le cours des torrents qui descendent dans la vallée, les hêtres qui les ombragent, les coteaux qui les entourent, offrent des asiles verdoyants et frais quand on suffoque à découvert. Ces réduits, ces petits vallons ne s'aperçoivent pas tant qu'on regarde au loin les montagnes, et cela joint à l'agrément du lieu celui de la surprise lorsqu'on vient tout d'un coup à les découvrir. Combien de fois je me suis figuré, vous suivant à la promenade et tournant autour d'un rocher aride, vous voir surpris et charmé de retrouver des bosquets pour les dryades où vous n'auriez cru trouver que des antres et des ours. Tout le pays est plein de curiosités naturelles qu'on ne découvre que peu à peu et qui, par ses découvertes successives, lui donnent chaque jour l'attrait de la nouveauté. La botanique offre ici ses trésors à qui saurait les connaître. Et souvent, en voyant autour de moi cette profusion de plantes rares, je les fous à regret sous le pied d'un ignorant. Il est pourtant nécessaire d'en connaître une pour se garantir de ses terribles effets. C'est le nappel. Vous voyez une très belle plante, haute de trois pieds, garnie de jolies fleurs bleues, qui vous donnent envie de l'accueillir. Mais à peine l'a-t-on gardée quelques minutes qu'on se sent saisi de maux de tête, de vertige, d'évanouissement, et l'on périrait si l'on ne jetait promptement ce funeste bouquet. Cette plante a souvent causé des accidents à des enfants et à d'autres gens qui ignoraient sa pernicieuse vertu. Pour les bestiaux, il n'en approche jamais, et ne broute pas même l'herbe qui l'entoure. Les faucheurs l'extirpent autant qu'ils peuvent. Quoi qu'on fasse, l'espèce en reste, et je ne laisse pas d'en voir beaucoup en me promenant sur les montagnes, mais on la détruit à peu près dans le vallon. À une petite lieue de moitié, dans la seigneurie de Travers, est une mine d'asphalte qu'on dit qui s'étend sous tout le pays. Les habitants lui attribuent modestement la gaieté dont ils se vantent et qu'ils prétendent se transmettre même à leurs bestiaux. Voilà sans doute une belle vertu de ce minéral. Mais pour en pouvoir sentir l'efficace, il ne faut pas avoir quitté le château de Montmorency. Quoi qu'il en soit des merveilles qu'ils disent de leur asphalte, j'ai donné au seigneur de Travers un moyen sûr d'en tirer la médecine universelle, c'est de faire une bonne pension à Lori ou à Bordeaux. Au-dessus de ce même village de Travers, il se fit il y a deux ans une avalanche considérable, et de la façon du monde la plus singulière. Un homme qui habite au pied de la montagne avait son champ devant sa fenêtre, entre la montagne et sa maison. Un matin, qui suivit une nuit d'orage, il fut bien surpris, en ouvrant sa fenêtre, de trouver un bois à la place de son champ. Le terrain, s'éboulant tout d'une pièce avait recouvert son champ des arbres d'un bois qui était au-dessus, et cela, dit-on, fait entre les deux propriétaires le sujet d'un procès qui pourrait trouver place dans le recueil du Pitaval. L'espace que l'avalanche a mis à nu est fort grand et paraît de loin mais il faut en approcher pour juger de la force de l'éboulement, de l'étendue du creux et de la grandeur des rochers qui ont été transportés. Ce fait récent et certain rend croyable ce que dit Pline d'une vigne qui avait été ainsi transportée d'un côté du chemin à l'autre. Mais euh, rapprochons nous de mon habitation. J'ai vis-à-vis de mes fenêtres une superbe cascade qui, du haut de la montagne, tombe par l'escarpement d'un rocher dans le vallon, avec un bruit qui se fait entendre au loin, surtout quand les eaux sont grandes. Cette cascade est très en vue, mais ce qui ne l'est pas de même est une grotte à côté de son bassin, de laquelle l'entrée est difficile, mais qu'on trouve au-dedans assez espacée, éclairée par une fenêtre naturelle, cintrée en tiers-point et décorée d'un ordre d'architecture qui n'est ni toscan ni dorique, mais l'ordre de la nature, qui sait mettre des proportions et de l'harmonie dans ses ouvrages les moins réguliers. Instruit de la situation de cette grotte, je m'y rendis seul l'été dernier pour la contempler à mon aise. L'extrême sécheresse me donna la facilité d'y entrer par une ouverture enfoncée et très surbaissée, en me traînant sur le ventre, car la fenêtre est trop haute pour qu'on puisse y passer sans échelle. Quand je fus au-dedans, je m'assis sur une pierre et je me mis à contempler avec ravissement cette superbe salle dont les ornements sont des quartiers de roches diversement situés et formant la décoration la plus riche que j'ai jamais vue, si du moins on peut appeler ainsi celle qui montre la plus grande puissance, celle qui attache et intéresse, celle qui fait penser, qui élève l'âme, celle qui force l'homme à oublier sa petitesse pour ne penser qu'aux œuvres de la nature. Des divers rochers qui meublent cette caverne, les uns détachés et tombés de la voûte, les autres encore pendants et diversement situés, marquent tous dans cette mine naturelle l'effet de quelque explosion terrible dont la cause paraît difficile à imaginer car même un tremblement de terre ou un volcan n'expliquerait pas cela d'une manière satisfaisante. Dans le fond de la grotte qui va en s'élevant de même que sa voûte, on monte sur une espèce d'estrade et de là par une pente assez raide sur un rocher qui mène de biais à un enfoncement très obscur par où l'on pénètre sous la montagne. Je n'ai point été jusque là, ayant trouvé devant moi un trou large et profond qu'on ne saurait franchir qu'avec une planche. D'ailleurs vers le haut de cet enfoncement et presque à l'entrée de la galerie souterraine est un quartier de rochers très imposant car suspendu presque en l'air il porte à faux par un de ses angles et penche tellement en avant qu'il semble se détacher et partir pour écraser le spectateur. Je ne doute pas cependant qu'il ne soit dans cette situation depuis bien des siècles, et qu'il n'y reste encore plus longtemps. Mais ces sortes d'équilibres auxquels les yeux ne sont pas faits ne laissent pas de causer quelque inquiétude, et quoiqu'il fallût peut-être des forces immenses pour ébranler ce rocher qui paraît si prêt à tomber, je craindrais d'y toucher du bout du doigt, et ne voudrais pas plus rester dans la direction de sa chute que sous l'épée de Damoclès. La galerie souterraine à laquelle cette grotte sert de vestibule ne continue pas d'aller en montant, mais elle prend sa pente un peu vers le bas et suit la même inclinaison dans tout l'espace qu'on a jusqu'ici parcouru. Les curieux s'y sont engagés à diverses fois avec des domestiques, des flambeaux et tous les secours nécessaires, mais il faut du courage pour pénétrer loin en cet effroyable lieu et de la vigueur pour ne pas s'y trouver mal. On est allé jusqu'à près de demi-lieues, en ouvrant le passage où il est trop étroit, et sondant avec précaution les gouffres et fondrières qui sont à droite et à gauche. Mais on prétend dans le pays qu'on peut aller par le même souterrain à plus de deux lieues, jusqu'à l'autre côté de la montagne, où l'on dit qu'il aboutit du côté du lac, non loin de l'embouchure de la Reuse. Au dessous du bassin de la même cascade est une autre grotte plus petite dont l'abord est embarrassé de plusieurs grands cailloux écartés de roches qui paraissent avoir été entraînés là par les eaux. Cette grotte ci n'étant pas si praticable que l'autre, n'a pas de même tenté les curieux. Le jour que j'en examinais l'ouverture, il faisait une chaleur insupportable. Cependant, il en sortait un vent si vif et si froid, que je n'osais rester longtemps à l'entrée, et toutes les fois que j'y suis retourné, j'ai toujours senti le même vent, ce qui me fait juger qu'elle a une communication plus immédiate et moins embarrassée que l'autre. À l'ouest de la vallée, une montagne la sépare en deux branches l'une fort étroite où sont le village de Saint-Sulpice, la source de la Reuse, et le chemin de Pontarlier. Sur ce chemin, l'on voit encore une grosse chaîne scellée dans le rocher et mise là jadis par les Suisses pour fermer de ce côté-là le passage au Bourguignon. L'autre branche, plus large et à gauche de la première, mène par le village de Butte à un pays perdu appelé la Côte-aux-Fées, qu'on aperçoit de loin parce qu'il va en montant. Ce pays n'étant sur aucun chemin passe pour très sauvage et en quelque sorte pour le bout du monde. Aussi prétend-on que c'était autrefois le séjour des fées et le nom lui en est resté. On y voit encore leur salle d'assemblée dans une troisième caverne qui porte aussi leur nom et qui n'est pas moins curieuse que les précédentes. Je n'ai pas vu cette grotte au fait parce qu'elle est assez loin d'ici, mais on dit qu'elle était superbement ornée et l'on voyait encore il n'y a pas longtemps un trône et des sièges très bien taillés dans le roc. Tout cela a été gâté et ne paraît presque plus aujourd'hui. D'ailleurs, l'entrée de la grotte est presque entièrement bouchée par les décombres, par les broussailles, et la crainte des serpents et des bêtes venimeuses rebute les curieux d'y vouloir pénétrer. Mais si elle eût été praticable encore et dans sa première beauté, et que madame la maréchale eût passé dans ce pays, je suis sûr qu'elle eût voulu voir cette grotte singulière, n'eût été qu'en faveur de fleurs d'épines et des facardins. Plus j'examine en détail l'état et la position de ce vallon, plus je me persuade qu'il a jadis été sous l'eau, que ce qu'on appelle aujourd'hui le Val de Travers fut autrefois un lac formé par l'Areuse, la Cascade et d'autres ruisseaux et contenu par les montagnes qui l'environnent, de sorte que je ne doute point que je n'habite l'ancienne demeure des poissons. En effet, le sol du vallon est si parfaitement uni qu'il n'y a qu'un dépôt formé par les eaux qui puisse l'avoir ainsi nivelé. Le prolongement du vallon, loin de descendre, monte le long du cours de la Reuse, de sorte qu'il a fallu des temps infinis à cette rivière pour se caver dans les abîmes qu'elle forme, un cours en sens contraire à l'inclinaison du terrain. Avant ces temps, contenue de ce côté, de même que de tous les autres, et forcée de refluer en elle même, elle dut enfin remplir le vallon jusqu'à la hauteur de la première grotte que j'ai décrite, par laquelle elle trouva, ou s'ouvrit, un écoulement dans la galerie souterraine qui lui servait d'aqueduc. Le petit lac demeura donc constamment à cette hauteur jusqu'à ce que, par quelques ravages, fréquents au pied des montagnes dans les grandes eaux, des pierres ou graviers embrassèrent tellement le canal que les eaux n'eurent plus un cours suffisant pour leur écoulement. Alors, s'étant extrêmement élevées, et agissant avec une grande force contre les obstacles qui les retenaient, elles s'ouvrirent enfin quelque issue par le côté le plus faible et le plus bas les premiers filets échappés ne cessent de creuser et de s'agrandir, et, le niveau du lac baissant à proportion, à force du temps le vallon dut enfin se trouver à sec. Cette conjoncture qui m'est venue en examinant la grotte où l'on voit des traces sensibles du cours de l'eau s'est confirmée premièrement par le rapport de ceux qui ont été dans la galerie souterraine et qui m'ont dit avoir trouvé des eaux croupissantes dans les creux des fondrières dont j'ai parlé. Elle s'est confirmée encore dans les pèlerinages que j'ai fait à quatre lieues d'ici pour aller voir Milord de Maréchal à sa campagne au bord du lac et où je suivais, en montant la montagne, la rivière qui descendait à côté de moi par des profondeurs effrayantes que, selon toute apparence, elle n'a pas trouvé toute faite et qu'elle n'a pas creusé en un jour. Enfin, j'ai pensé que l'asphalte, qui n'est qu'un bitume durci, était encore un indice d'un pays longtemps imbibé par les eaux. Si j'osais croire que ces folies puissent vous amuser, je tracerais sur le papier une espèce de plan qui pût vous éclaircir tout cela, mais il faut attendre qu'une saison plus favorable et un peu de relâche à mes mots me laissent en état de parcourir le pays. On peut vivre ici puisqu'il y a des habitants. On y trouve même les principales commodités de la vie, quoique un peu moins facilement qu'en France. Les denrées y sont chères parce que le pays en produit peu et qu'il est fort peuplé, surtout depuis qu'on y a établi des manufactures de toiles peintes et que les travaux d'horlogerie et de dentelle s'y multiplient. Pour y avoir du pain mangeable, il faut le faire chez soi, et c'est le parti que j'ai pris avec l'aide de mademoiselle Levasseur. La viande y est mauvaise, non que le pays n'en produise de bonne, mais tout le bœuf va à Genève ou à Neuchâtel, et l'on ne tue ici que de la vache. La rivière fournit d'excellentes truites, mais si délicates qu'il faut la manger sortant de l'eau. Le vin vient de Neuchâtel, et il est très bon, surtout le rouge. Pour moi, je m'en tiens au blanc bien moins violent, à meilleur marché, et selon moi, beaucoup plus sain. Point de volaille, peu de gibier, point de fruits, pas même des pommes. Seulement des fraises bien parfumées. En abondance et qui dure longtemps. Le laitage est excellent, moins pourtant que le fromage de Viry préparé par Mademoiselle Rose. Les eaux y sont claires et légères. Ce n'est pas pour moi une chose indifférente que de bonnes eaux, et je me sentirai longtemps du mal que m'a fait celle de Montmorency. J'ai sous ma fenêtre une très belle fontaine dont le bruit fait une de mes délices. Ces fontaines qui sont élevées et taillées en colonnes ou en obélisques et coulent par des tuyaux de fer dans de grands bassins sont un des ornements de la Suisse. Il n'y a si chétif village qu'il n'en ait au moins deux ou trois. Les maisons écartées ont presque chacune la sienne et l'on en trouve même sur les chemins pour la commodité des passants, hommes et bestiaux. Je ne saurais exprimer combien l'aspect de toutes ces belles eaux coulantes est agréable au milieu des rochers et des bois durant les chaleurs. L'on est déjà rafraîchi par la vue, et l'on est tenté d'en boire sans avoir soif. Voilà, monsieur le maréchal, de quoi vous former quelque idée du séjour que j'habite, et auquel vous voulez bien prendre quelque intérêt. Je dois l'aimer comme le seul lieu de la terre où la vérité ne soit pas un crime, ni l'amour du genre humain une impiété. J'y trouve la sûreté sous la protection de milord maréchal et l'agrément dans son commerce. Les habitants du lieu m'y montrent de la bienveillance et ne me traitent point en proscrit. Comment pourrais je n'être pas touché des bontés qu'on m'y témoigne, moi qui dois tenir à bienfait de la part des hommes tout le mal qu'ils ne me font pas? « Accoutumé à porter depuis si longtemps les pesantes chaînes de la nécessité, je passerai ici sans regret le reste de ma vie si j'y pouvais voir quelquefois ceux qui me la font encore aimer. Euh, monsieur Jacob Favre, premier syndic de la République de Genève, à moitié travers le douze mai 1763. Monsieur Revenu du long étonnement où m'a jeté de la part du magnifique conseil le procédé que j'en devais le moins attendre, je prends enfin le parti que l'honneur et la raison me prescrivent, quelque cher qu'il coûte à mon cœur. Je vous déclare donc, monsieur, et je vous prie de déclarer de ma part au magnifique conseil, que j'abdique à perpétuité mon droit de bourgeoisie et de cité dans la ville et république de Genève. Ayant rempli de mon mieux les devoirs attachés à ce titre, sans jouir d'aucun de ses avantages, je ne crois point être en reste envers l'État en le quittant. J'ai tâché d'honorer le nom Genevois. J'ai tendrement aimé mes compatriotes. Je n'ai rien oublié pour me faire aimer d'eux. On ne saurait plus mal réussir. Je veux leur complaire jusque dans leur haine. Le dernier sacrifice qui me reste à leur faire est celui d'un nom qui me fut cher. Mais, monsieur, ma patrie, en me devenant étrangère, ne peut me devenir indifférente. Je lui reste attaché par un tendre souvenir, et je n'oublie d'elle que ses outrages. Puisse-t-elle prospérer toujours, et voir augmenter sa gloire? Puisse-t-elle abonder en citoyens meilleurs, et surtout plus heureux que moi? Recevez, monsieur, je vous supplie, les assurances de mon profond respect. monsieur Grumet, curé d'Amberieu. Motier travers, le 21 août 1763. Vos bontés, monsieur, pour ma gouvernante et pour moi, sont sans cesse présentes à mon cœur et au sien. À force d'y penser, nous voilà tentés d'en user encore et peut-être d'en abuser. Il faut vous communiquer notre idée afin que vous voyez si elle ne vous serait point importune et si vous voudrez bien porter l'humanité jusqu'à y acquiescer. L'état de dépérissement où je suis ne peut durer, et à moins d'un changement bien imprévu, je dois naturellement, avant la fin de l'hiver, trouver un repos que les hommes ne pourront plus troubler. Mon unique regret sera de laisser cette bonne et honnête fille sans appui et sans amis, et de ne pouvoir pas même lui assurer la possession des guenilles que je puis laisser. Elle sentira comme elle pourra. Il ne faut pas lutter inutilement contre la nécessité. Mais comme elle est bonne catholique, elle ne veut pas rester dans un pays d'une autre religion que la sienne quand son attachement pour moi ne l'y retiendra plus. Elle ne voudrait pas non plus retourner à Paris. Il fait trop cher vivre et la vie bruyante de ce pays-là n'est pas de son goût. Elle voudrait trouver, dans quelques provinces reculées, où l'on vécut à bon compte, un petit asile, soit dans une communauté de filles, soit en prenant son petit ménage dans un village ou ailleurs pourvu qu'elle y soit tranquille. J'ai pensé, monsieur, au pays que vous habitez, lequel a, ce me semble, les avantages qu'elle cherche, et n'est pas bien éloigné d'ici. Voudriez-vous bien avoir la charité de lui accorder votre protection et vos conseils, devenir son patron et lui tenir lieu de père Il me semble que je ne serai plus en peine d'elle en la laissant sous votre garde, et il me semble aussi qu'un pareil soin n'est pas moins digne de votre bon cœur que de votre ministère. C'est, je vous assure, une bonne et honnête fille qui me sert depuis vingt ans avec l'attachement d'une fille à son père plutôt que d'un domestique à son maître. Elle a des défauts sans doute, c'est le sort de l'humanité, mais elle a des vertus rares, un cœur excellent, une honnêteté de mœurs, une fidélité et un désintéressement à toute épreuve. Voilà de quoi je réponds après vingt ans d'expérience. D'ailleurs, elle n'est plus jeune et ne veut d'établissement d'aucune espèce. Je souhaite qu'elle passe ses jours dans une honnête indépendance et qu'elle ne serve personne après moi. Elle n'a pas pour cela de grandes ressources, mais elle saura se contenter de peu. Tout son revenu se borne à une pension viagère de trois cents francs que lui a fait mon libraire. Le peu d'argent que je pourrais lui laisser servira pour son voyage et pour son petit emménagement. Voilà tout, monsieur. Voyez si cela pourra suffire à cette pauvre fille pour subsister dans le pays où vous êtes, et si, par la connaissance que vous avez du local, vous voudrez bien lui en faciliter les moyens. Si vous consentez, je ferai ce qu'il faut, et je n'aurai plus de soucis pour elle, si je puis me flatter qu'elle vivra sous vos yeux. Un mot de réponse, monsieur, je vous en supplie, afin que je prenne mes arrangements, je vous demande pardon du désordre de ma lettre, mais je souffre beaucoup, et dans cet état, ma main ni ma tête ne sont pas aussi libres que je voudrais bien. Je me flatte, monsieur, que cette lettre vous atteste mes sentiments pour vous. Ainsi, je n'y ajouterai rien davantage que les assurances de mon respect. Je suis obligé de vous prévenir, monsieur, que par la Suisse, il faut affranchir jusqu'à Pontarlier. Quoique votre précédente lettre me soit parvenue, il serait fort douteux si j'aurais ce bonheur une seconde fois. Je sens toute mon indiscrétion, mais ou je me trompe fort, ou vous ne regretterez pas de payer le plaisir de faire du bien. À Madame Bois de la Tour, à Mottier, le 19 novembre 1763. Hier, madame, j'ai fait remettre au rosselet un bonnet de bourracan sur la mesure duquel je vous prie de bien vouloir faire faire les deux autres. De ces trois bonnets, j'en voudrais deux pour l'été, savoir celui de bourracan sans fourrure, garni d'un petit galon et d'une houppe d'or comme l'année dernière, un autre bordé dans la même largeur de petits gris ou martres ou autres jolie fourrures légères, Quant au troisième, je le voudrais de quelques draps légers comme silésie ou carcassonne, doublé de quelque étoffe un peu chaude et fourré aussi, mais non pas en dedans. Le tout, ou gris ou couleur modeste et surtout point d'écarlate. Je vous prie aussi de vouloir bien faire ajouter aux autres articles deux pièces de padoue, l'une bleue et l'autre grise, quelques lacets de soie jaune pour des bottines de maroquin, et enfin un manchon de femme un peu joli que je voudrais donner à mademoiselle Levasseur pour ses étrennes. N'oubliez pas aussi, je vous supplie, d'ajouter à toutes ces commissions le mémoire, afin que je compte avec moi, ne pouvant compter avec vous, à qui je dois tant de choses, sans pouvoir m'acquitter en rien. Je vous dirai là-dessus qu'après toutes les dépenses que vous avez faites pour moi, le loyer de dix écus par mois n'est pas même proposable ce serait de ma part une ingratitude monstrueuse de croire ainsi m'acquitter avec vous, et j'aimerais encore mieux vous être tout franchement redevable du tout et recevoir de vous l'hospitalité pleine et entière, que de paraître payer mon loyer, tandis qu'en effet je le payerais si mal. J'use vos meubles, j'ôte à d'autres l'usage de votre maison, je vous ai constitué en dépense à la montagne. Si tout cela n'entrait pas en ligne de compte, il vaudrait mieux encore ne point compter du tout et que les obligations que je vous ai fussent authentiques au gré de ma reconnaissance. Si donc il est vrai que je ne sois pas de trop dans votre maison, faites-moi de grâce un parti plus acceptable. Mon état me permet moins que jamais de me décider sur rien. S'il n'est pas meilleur au printemps, je ne puis songer à de longs voyages. En ce cas, mon arrangement est, sauf votre bon plaisir, d'aller faire un essai du séjour de la montagne, et si je vois qu'il me soit possible de m'y établir tout de bon, je le ferai. Il y aurait de l'imprudence à faire tout d'un coup cette transplantation sans s'assurer de pouvoir lever les difficultés qui s'y trouvent. Si cela ne se peut, je continuerai d'occuper votre maison tant qu'elle ne vous sera pas nécessaire, désirant pourtant de savoir si, trouvant dans le pays ou au voisinage quelque autre séjour plus convenable que celui de moitié dont l'air ne me convient pas, vous désapprouveriez que je cherchasse à m'y établir. Car quoi qu'il puisse se présenter, soyez bien persuadé, ma très bonne amie, que de mes jours, je ne veux entendre parler de faire chose au monde qui vous déplaise en quoi que ce puisse être. Je vous prie de dire à messieurs vos fils que le désir de faire connaissance entre nous est bien de ma part réciproque. Puis-je être indifférent pour rien de ce qui vous appartient Je souhaite de tout mon cœur que leurs affaires leur permettent de venir, soit ensemble, soit séparément, prendre possession de leur demeure. Quoique vous ne vouliez pas que je sois votre concierge, c'est une fonction que je remplirai avec joie, soit envers vous, soit envers toute votre famille si jamais j'ai le bonheur d'être dans le cas. Mille salutations, je vous supplie, à tous ces chers enfants, si dignes de votre attachement, et par là si sûrs de tout le mien. J'ai appris que M. Girardier a été malade. Je vous prie de lui dire que je me réjouis de son rétablissement. Recevez les respects de mademoiselle Levasseur et ceux d'un ami qui vous est attaché comme il le doit, c'est tout dire. Je ne sais pourquoi vos lettres ne me viennent jamais en droiture. C'est peut-être parce que le mot de Pontarlier n'est pas tout au bas. Il faut que l'adresse se termine de cette manière, à moitié travers par Pontarlier. Point de manchon, s'il vous plaît. J'en trouve un ici par occasion. Mais je vous prie d'ajouter à la place un bonnet de nuit de laine fine pour moi, et des plus grands parce que j'ai la tête grosse. On aurait besoin d'une demi-livre de laine conforme à peu près à l'échantillon. Si cela se trouve aisément, à la bonne heure. Sinon, l'on s'en passera. À M. Séguier de Saint-Brisson, 22 juillet 1764. Je crains, monsieur, que vous n'alliez un peu vite en besogne dans vos projets. Il faudrait, quand rien ne vous presse, proportionner la maturité des délibérations à l'importance des résolutions. Pourquoi quitter si brusquement l'état que vous aviez embrassé, tandis que vous pouviez à loisir vous arranger pour en prendre un autre, si tant est qu'on puisse appeler un état le genre de vie que vous vous êtes choisi, et dont vous serez peut-être aussitôt rebuté que du premier Que risquiez-vous à mettre un peu moins d'impétuosité dans vos démarches, et à tirer parti de ce retard pour vous confirmer dans vos principes, et pour assurer vos résolutions par une plus mûre étude de vous-même Vous voilà seul sur la Terre dans l'âge où l'homme doit tenir à tout. Je vous plains. Et c'est pour cela que je ne puis vous approuver, puisque vous avez voulu vous isoler vous-même au moment où cela vous convenait le moins. Si vous croyez avoir suivi mes principes, vous vous trompez. Vous avez suivi l'impétuosité de votre âge. Une démarche d'un tel éclat valait assurément la peine d'être bien pesée avant d'en venir à l'exécution. C'est une chose faite, je le sais, je veux seulement vous faire entendre que la manière de la soutenir ou d'en revenir demande un peu plus d'examen que vous n'en avez mis à le faire. Voici puis, l'effet naturel de cette conduite a été de vous brouiller avec madame votre mère. Je vois, sans que vous me le montriez, le fil de tout cela, et quand il n'y aurait que ce que vous me dites, à quoi bon aller effaroucher la conscience tranquille d'une mère en lui montrant, sans nécessité, des sentiments différents des siens. Il fallait, monsieur, garder ces sentiments au-dedans de vous pour la règle de votre conduite, et leur premier effet devait être de vous faire endurer avec patience les tracasseries de vos prêtres et de ne pas changer ces tracasseries en persécution en voulant secouer hautement le joug de la religion où vous étiez né. Je pense si peu comme vous sur cet article que, quoique le clergé protestant me fasse une guerre ouverte et que je sois fort éloigné de penser comme lui sur tous les points, je n'en demeure pas moins sincèrement uni à la communion de notre Église, bien résolu d'y vivre et d'y mourir s'il dépend de moi, car il est très consolant pour un croyant affligé de rester en communauté de culte avec ses frères et de servir Dieu conjointement avec eux. Je vous dirai plus. Et je vous déclare que si j'étais né catholique, je demeurerais catholique, sachant bien que votre église met un frein très salutaire aux écarts de la raison humaine, qui ne trouve ni fond ni rive quand elle veut sonder l'abîme des choses, et je suis si convaincu de l'utilité de ce frein que je m'en suis moi-même imposé un semblable, en me prescrivant pour le reste de ma vie des règles de foi dont je ne me permets plus de sortir. Aussi je vous jure que je ne suis tranquille que depuis ce temps-là, bien convaincu que sans cette précaution je ne l'aurais de ma vie. Je vous parle, monsieur, avec effusion de cœur, et comme un père parlerait à son enfant. Votre brouillerie avec madame votre mère me navre. J'avais dans mes malheurs la consolation de croire que mes écrits ne pouvaient faire que du bien. Voulez vous m'ôter encore cette consolation? Je sais que s'ils font du mal, ce n'est que faute d'être entendu. Mais j'aurais toujours le regret de n'avoir pu me faire entendre. Cher Saint Brisson, un fils brouillé avec sa mère a toujours tort. De tous les sentiments naturels, le seul demeuré parmi nous est l'affection maternelle. Le droit des mères est le plus sacré que je connaisse. En aucun cas on ne peut le violer sans crime. Raccommodez vous donc avec la vôtre. Allez vous jeter à ses pieds. À quelque prix que ce soit, apaisez-la. Soyez sûr que son cœur vous sera rouvert si le vôtre vous ramène à elle. Ne pouvez vous sans fausseté lui faire le sacrifice de quelques opinions inutiles ou du moins les dissimuler? Vous ne serez jamais appelé à persécuter personne, que vous importe le reste. Il n'y a pas de morale. Celle du christianisme et celle de la philosophie sont la même. L'une et l'autre vous imposent ici le même devoir. Vous pouvez le remplir, vous le devez. La raison, l'honneur, votre intérêt, tout le veut, et moi je l'exige pour répondre aux sentiments dont vous m'honorez. Si vous le faites, Comptez sur mon amitié, sur toute mon estime, sur mes soins si jamais ils vous sont bons à quelque chose. Si vous ne le faites pas, vous n'avez qu'une mauvaise tête, ou qui pisait, votre cœur vous conduit mal, et je ne veux conserver de liaison qu'avec des gens dont la tête et le cœur soient sains. À Monsieur Jean-André Deluc, banquier, rue de la Cité, à Genève. À moitié travers, le 20 octobre 1764. Je m'en vais, mon cher monsieur, profiter peut-être fort indiscrètement de vos obligeantes offres, car je sais que vous êtes fort occupé, mais je vous prie de tenir toutes mes importunités pour non avenues, si les objets dont telle traite prennent le moins du monde sur vos occupations. Je n'ai point reçu avec votre lettre la boîte de couleurs qui devait l'accompagner. Si elle n'est pas encore partie, vous pourrez me l'envoyer par notre messager qui est actuellement en route pour Genève ou peut-être déjà arrivé. L'usage que j'en veux faire est d'enluminer des plantes et fleurs dans leurs couleurs naturelles et d'autres estampes et paysages pour une optique. « Je connais ces boîtes de Nuremberg. Les couleurs en sont mauvaises et falsifiées. Je voudrais avoir une petite provision des couleurs les plus nécessaires, comme carmin, outre-mer, gomme-gutte, vert de Venise, vert de gris, encre de la Chine, etc. Et je voudrais surtout que ces couleurs, en petite quantité, fussent bien choisies et aussi pures qu'il est possible. Joignez-y aussi, je vous prie, un peu de gomme arabique, car on ne trouve ici rien du tout. » Le microscope est, comme vous l'avez deviné, pour la botanique. Ainsi je désire qu'il ait un champ suffisant pour embrasser le pistil et les étamines d'une petite fleur. Et du reste, je me rapporte absolument à vous. C'est effectivement une optique telle que vous la décrivez dont nous avions parlé. Je n'aime point celle qui, restant toujours ouverte, laisse de toutes parts entrer la lumière et présente avec l'image les objets environnants. Vous me parlâtes d'une manière d'enclore tellement l'image dans la boîte par une espèce de cadre noir qu'on ne vit absolument que l'estampe. Voilà, monsieur, ce que je désirais, et si vous trouviez à Genève de bons verres, que vous connaissiez quelques bons ouvriers, que vous voulussiez bien diriger pour faire la boîte, je vous serais obligé de vouloir bien y donner quelques soins. Ces sortes de machines sont fort plates, à moins qu'elles ne fassent tout à fait illusion, mais quand elles la font, elles sont très amusantes, et je sens que dans mon état, enfermé plus de six mois tous les ans, j'ai très grand besoin d'amusement qui fasse diversion aux excursions de ma tête et l'empêche de me consumer dans ma prison. Cherchant la plus grande illusion, il s'ensuit qu'il faut aussi les meilleures estampes. Celles d'Angleterre me paraissent les plus propres à la chose. Il est vrai qu'elles sont extrêmement chères. Si vous en pouviez rassembler une douzaine ou quinzaine de bien bonnes, cela me suffirait en attendant que j'en fisse chercher à Paris. Vous savez qu'il faut des lointains, des perspectives, des allées, avenues, galeries, marines, en un mot tout ce qui chasse et prolonge l'espace, l'architecture avec des cours et avant-cours, colonnades, etc. fait très bien aussi. Ce n'est pas tout. Mais voici comme l'avare qui veut l'excellent à bon marché. Quoique les fantaisies soient dans mon état des choses presque nécessaires, je suis pourtant bien déterminé à renoncer à celles-là si elles passent à certains prix. Si vous jugez donc, monsieur, que toute cette petite fourniture se puisse faire pour quatre ou cinq louis au plus, je puis les y mettre, mais si elle passe, n'y pensons pas. J'ai lu avec le plus grand plaisir la continuation des feuilles que vous m'avez fait parvenir. On ne peut rien de plus exact, de plus sensé, de mieux raisonner sans aucun verbiage. Quelquefois seulement on n'y sent pas assez la liaison des choses, on ne les voit pas assez sortir les unes des autres. L'art d'écrire et d'intéresser est de faire que tout se tienne. Toute solution de continuité refroidit le lecteur. Il ne suffit pas que l'auteur ait un plan, il faut que le lecteur ne le perde jamais de vue. Assurément, si cet ouvrage ne porte pas la lumière dans votre patrie, il faut qu'on y veuille fermer les yeux. Recevez, monsieur, mes excuses, mes remerciements et mes salutations. J'ai reçu les estampes, ce que je vous prie de dire à celui qui a pris la peine de les envoyer en attendant que je puisse lui écrire. À monsieur du Pérou, à Neuchâtel. À Mottier, le 4 novembre 1764. Bien des remerciements monsieur du dictionnaire philosophique. Il est agréable à lire, il y règne une bonne morale, il serait à souhaiter qu'elle fût dans le cœur de l'auteur et de tous les hommes. Mais ce même auteur est presque toujours de mauvaise foi dans les extraits de l'écriture. Il raisonne souvent fort mal, et l'air de ridicule et de mépris qu'il jette sur des sentiments respectés des hommes, rejaillissant sur les hommes mêmes, m'apparaît un outrage fait à la société et punissable devant les tribunaux humains. Voilà mon sentiment et peut-être mon erreur que je me crois permis de dire mais que je n'entends faire adopter à qui que ce soit. Je suis fort touché de ce que vous me marquez de la part de monsieur et madame de Buffon. Je suis bien aise de vous avoir dit tout ce que je pensais de cet homme illustre avant que son souvenir réchauffât mes sentiments pour lui, afin d'avoir tout l'honneur de la justice que j'aime à lui rendre, sans que mon amour-propre s'en soit mêlé. Ses écrits m'instruiront et me plairont toute ma vie. Je lui crois des égaux parmi ses contemporains en qualité de penseur et de philosophe, mais en qualité d'écrivain, je ne lui en connais point. C'est la plus belle plume de son siècle. Je ne doute point que ce ne soit là le jugement de la postérité. Un de mes regrets est de n'avoir pas été à portée de le voir davantage et de profiter de ses obligeantes invitations. Je sens combien ma tête et mes écrits auraient gagné dans son commerce. Je quittais Paris au moment de son mariage. Ainsi, je n'ai point eu le bonheur de connaître Madame de Buffon. Mais je sais qu'il a trouvé dans sa personne et dans son mérite l'aimable et digne récompense du sien. Que Dieu les bénisse l'un et l'autre de vouloir bien s'intéresser à ce pauvre proscrit. Leurs bontés sont une des consolations de ma vie. Qu'ils sachent, je vous en supplie, que je les honore et les aime de tout mon cœur. Je suis bien éloigné, monsieur, de renoncer au pèlerinage projeté. Si la ferveur de la botanique vous dure encore et que vous ne rebutiez pas un élève à barbe grise, je compte plus que jamais aller herboriser cet été sur vos pas. Mes pauvres Corses ont bien maintenant d'autres affaires que d'aller établir l'utopie au milieu d'eux. Vous savez la marche des troupes françaises, il faut voir ce qui en résultera. J'ai pourtant encore de la peine à croire que la France veuille devenir l'exécration de l'univers en livrant ce malheureux peuple à ses bouchers. Au reste, si ce bel exploit la flatte si fort, il faudra qu'elle prenne le parti de détruire entièrement la nation corse, car c'est le seul moyen de soumettre l'île aux Génois. En attendant ce qu'il en arrivera, il faut gémir tout bas et aller herboriser. Vous me rendez fier en me marquant que Mlle Bondely n'ose venir me voir à cause des bienséances de son sexe, et qu'elle a peur de moi comme d'un circoncis. Il y a plus de quinze ans que les jolies femmes me faisaient en France l'affront de me traiter comme un bonhomme sans conséquence, jusqu'à venir dîner avec moi en tête-à-tête tête dans la plus insultante familiarité, jusqu'à m'embrasser dédaigneusement devant tout le monde, comme le grand-père de leur nourrice. Grâce au ciel, me voilà bien rétabli dans ma dignité puisque les demoiselles me font l'honneur de ne pas oser venir voir. Pendant mon séjour à Crécier, il m'est venu ici une lettre de M. Desquerny. À mon retour, je n'ai pas cru être à temps d'y répondre sur le peu de séjour qu'il me marquait devoir faire à Paris. Je vois, monsieur, par votre lettre que j'aurais été à temps, mais que je n'y suis plus, et comme je n'ai ni lettre ni temps à perdre, j'attends le plaisir de le voir en ce pays. À M. Duclos, Mottier, le 13 janvier 1765. J'attendais, mon cher ami, pour vous remercier de votre présent, que j'eusse eu le plaisir de lire cette nouvelle édition et de la comparer avec la précédente. Mais la situation violente où me jette la fureur de mes ennemis ne me laisse pas un moment de relâche, et il faut renvoyer les plaisirs à des moments plus heureux s'il m'est encore permis d'en attendre. Votre portrait n'avait pas besoin de la circonstance pour me causer de l'émotion, mais il est vrai qu'elle en a été plus vive par la comparaison de mes misères présentes avec les temps où j'avais le bonheur de vous voir tous les jours. Je voudrais bien que vous me fissiez l'amitié de m'en donner une seconde épreuve pour mon portefeuille. Les vrais amis sont trop rares pour qu'en effet la planche ne restât pas longtemps neuve si vous n'en donniez qu'une épreuve à chacun des vôtres, mais j'ose dire ici au nom de tous qu'ils sont bien dignes que vous l'usiez pour eux. Quoique je sache que vous n'êtes point fait pour en perdre, je suis peu surpris que vous ayez à vous plaindre de ceux avec lesquels j'ai été forcé de rompre. Je sens que quiconque est un faux ami pour moi n'en peut être un vrai pour personne. Il travaille beaucoup à me faciliter l'entreprise d'écrire ma vie, que vous m'exhortez de reprendre. Il vient de paraître à Genève un libelle effroyable, pour lequel la dame d'Épinay a fourni des mémoires à sa manière, lesquelles me mettent déjà fort à mon aise vis-à-vis d'elle et de ceux qui l'entourent. Dieu me préserve toutefois de l'imiter même en me défendant. Mais, sans révéler les secrets qu'elle m'a confiés, il m'en reste assez de ceux que je ne tiens pas d'elle pour la faire connaître autant qu'il est nécessaire en ce qui se rapporte à moi. Elle ne me croit pas si bien instruit. Mais puisqu'elle m'y force, elle apprendra quelques jours combien j'ai été discret. Je vous avoue cependant que j'ai peine encore à vaincre ma répugnance, et je prendrai du moins des mesures pour que rien ne paraisse de mon vivant. Mais j'ai beaucoup à dire, et je dirai tout. Je ne mettrai pas une de mes fautes, pas même une de mes mauvaises pensées. Je me peindrai tel que je suis. Le mal offusquera presque toujours le bien, et, malgré cela, j'ai peine à croire qu'aucun de mes lecteurs ose se dire, je suis meilleur que ne fut cet homme-là. Cher ami, j'ai le cœur oppressé, j'ai les yeux gonflés de larmes, jamais être humain n'éprouva tant de maux à la fois. Je me tais, je souffre et j'étouffe. Que ne suis-je auprès de vous Du moins, je respirerai. Je vous embrasse. À Monsieur Du Pérou, à Neuchâtel, ce vendredi 12 avril 1765. Plus j'étais touché de vos peines, plus j'étais fâché contre vous, et en cela j'avais tort. Le commencement de votre lettre me le prouve. Je ne suis pas toujours raisonnable, mais j'aime toujours qu'on me parle raison. Je voudrais connaître vos peines pour les soulager, pour les partager du moins. Les vrais épanchements du cœur veulent non seulement l'amitié, mais la familiarité, et la familiarité ne vient que par l'habitude de vivre ensemble. Puisse un jour cette habitude si douce donner entre nous à l'amitié tous ses charmes. Je les sentirai trop bien pour ne pas vous les faire sentir aussi. La sentence de Cicéron que vous demandez est Amicus Plato, Amicus Aristoteles, sed magis amica veritas. Mais vous pouvez la resserrer en n'employant que les deux premiers mots et les trois derniers. Et souvenez-vous qu'elle emporte l'obligation de me dire mes vérités. Au lieu de vous dire précisément si vous devez employer le terme de conclave inquisitorial, j'aime mieux vous exposer le principe sur lequel je me détermine en pareil doute. Qu'une expression soit ou ne soit pas ce qu'on appelle française ou du bel usage, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On ne parle et l'on écrit que pour se faire entendre. Pourvu qu'on soit intelligible, on va à son but. Quand on est clair, on y va encore mieux. Parlez donc clairement pour quiconque entend le français. Voilà la règle. Et soyez sûr que, fissiez-vous au surplus 500 barbarismes, vous n'en aurez pas moins bien écrit. Je vais plus loin, et je soutiens qu'il faut quelquefois faire des fautes de grammaire pour être plus lumineux. C'est en cela, et non dans toutes les pédanteries du purisme, que consiste le véritable art d'écrire. Ceci posé, j'examine sur cette règle le conclave inquisitorial. Et je me demande si ces deux mots réunis présentent à l'esprit une idée bien une et bien nette, et il me paraît que non. Le mot conclave en latin ne signifie qu'une chambre retirée, mais en français il signifie l'assemblée des cardinaux pour l'élection du pape. Cette idée n'a nul rapport à la vôtre, et elle exclut même celle de l'Inquisition. Voyez si peut-être en changeant le premier mot, en mettant par exemple celui de synode, Inquisitorial, vous n'iriez pas mieux à votre but. Il semble même que le mot de synode pris pour une assemblée de ministres, contrastant avec celui d'inquisitorial, ferait mieux sentir l'inconséquence de ces messieurs. L'union seule de ces deux mots ferait, à mon sens, un argument sans réplique. Et voilà en quoi consiste la finesse de l'emploi des mots. Pardon, monsieur de Mélongry, mais comme vous pouvez bien avoir quelquefois dans l'honnêteté de votre âme l'occasion de parler au public pour le bien de la vérité, j'ai cru que vous seriez peut-être bien aise de connaître la règle générale qui me paraît toujours bonne à suivre dans le choix des mots. Comme je suis très persuadé que votre ouvrage n'aura nul besoin de ma révision, je vous prie de m'en dispenser à cause de la matière. Et il convient que je puisse dire que je n'y ai aucune part et que je ne l'ai pas vue. Il est même inutile de m'envoyer aucune des pièces que vous vous proposez d'y mettre, puisqu'il me suffira de les trouver toutes dans l'imprimé. Au train dont la neige tombe, nous en aurons ce soir plus d'un pied. Ceci, et mon état encore empiré, m'ôtera le plaisir de vous aller voir aussitôt que je l'espérais. Et sitôt que je le pourrai, comptez que vous verrez celui qui vous aime. Je n'ai qu'une chose à vous recommander ne cherchez point d'épigramme. Avant de jeter vos idées sur le papier, retournez-les dans votre tête jusqu'à ce qu'elles y soient nettes et lumineuses. Alors écrivez-les clairement, simplement, brièvement, mais sans gêne. Rien de plus, et tout ira bien. Ne direz-vous rien du roi, de milord maréchal, du conseil d'État Ah, Monsieur de Voltaire, 31 mai 1765. Si monsieur de Voltaire a dit qu'au lieu d'avoir été secrétaire de l'ambassadeur de France à Venise, j'ai été son valet, monsieur de Voltaire en a menti comme un impudent. Si dans les années 1743 et 1744, je n'ai pas été premier secrétaire de l'ambassade de France, si je n'ai pas fait les fonctions de secrétaire d'ambassade, si je n'en ai pas eu les honneurs au Sénat de Venise, j'en aurais menti moi-même. À Monsieur Guy, chez Madame la veuve Duchesne, rue Saint-Jacques, à Paris. À moitié travers le 7 septembre 1765. L'émeute est-elle ici, Monsieur, parmi la canaille que la nuit dernière mes portes ont été forcées, mes vitres cassées et une pierre comme la tête est venue frapper presque jusqu'à mon lit. On a tenu ce matin une justice extraordinaire, mais les assassins ne sont pas découverts. Le ministre s'est fait ouvertement chef d'une bande de coupe-jarret. J'ai reçu ce matin une députation d'une communauté voisine dont je suis membre pour m'offrir asile, logement, défense et toute assistance possible. Avant d'accepter, je pars demain pour un petit voyage et comme il est à présumer que j'aurai cette nuit à soutenir un siège, je suis bien armé, bien escorté, bien résolu et ne soyez point en peine de moi, je vous réponds que les brigands trouveront à qui parler. On croit que le ministre devient absolument enragé. Vous sentez que jusqu'à ce que je sois fixé, je ne puis revoir ni même recevoir d'épreuves. Tout ceci est parvenu à un degré de violence qui ne peut durer. Je vous écrirai sitôt que l'orage sera passé. En attendant, ne soyez point en peine de moi. Tout va bien. À la santé près, je vous embrasse. À Monsieur Guy, libraire à Paris à l'île Saint-Pierre, au lac de Bienne, le 1er octobre 1765. Je reçois, monsieur, votre lettre du 10 septembre. Vous ne voyez pas que la crise que je viens d'essuyer puisse influer sur le voyage projeté. Elle y influe, pourtant, si bien que je suis désormais hors d'état d'y songer. Forcé quand j'y pensais le moins à quitter un village dont le ministre s'est fait capitaine de Coupe Jarret, et me voyant refuser le feu et l'eau chez toutes les puissances, il m'a fallu chercher un asile et songer à un déménagement qui, pour être petit, ne laisse pas d'être embarrassant pour un homme dans mon état. Les soins nécessaires pour me ménager une retraite et des gens qui m'y souffrent ne me laissent point songer à un voyage qui ne me sauverait aucun des embarras que j'éprouve, et ne me laisserait pas le temps et les moyens d'y pourvoir. La petite île où je suis m'a paru propre à y fixer ma retraite. Elle est très agréable. On n'y trouve ni gens d'église, ni brigands ameutés par eux. Toute la population consiste en une seule maison occupée par des gens très honnêtes, très gais, d'un très bon commerce et chez qui l'on trouve tout ce qui est nécessaire à la vie. La grande difficulté est que l'île et la maison appartiennent à messieurs de Berne, qui sont à la fois les propriétaires et les souverains, et vous savez que leurs excellences m'ont interdit il y a trois ans la demeure dans leurs États. Or, vous savez aussi que les gouvernements révoquent très souvent le bien qu'ils font, mais jamais le mal. C'est une des premières maximes d'État par toute la terre. Reste donc à voir si, après m'avoir chassé de leur pays, ils voudront bien me tolérer dans leur maison. Si j'obtiens d'eux cette grâce, je suis tout déterminé à fixer mon séjour dans cette île et à y finir mes misères et mes jours. Dans cette position, je serai hors d'état d'entretenir avec vous une correspondance aussi régulière qu'auparavant, puisqu'il n'y a point de poste au voisinage, que la communication avec la terre ferme, en tout temps incommode et coûteuse, est sujette à être interceptée ou par les vents ou par les glaces. Cependant, vous pourrez continuer à m'écrire par Pontarlier. Monsieur Junet continuera à me faire parvenir vos lettres. Il ne serait pas même impossible que je visse ici mes épreuves si les retards et l'irrégularité des envois ne rendaient cette révision trop incommode pour vous. Vous pourriez essayer et l'expérience nous apprendrait ce qui peut se faire. Je n'ai pas encore reçu la petite caisse, mais je sais qu'elle est à Pontarlier. Je me félicite beaucoup d'avoir pris le goût de la botanique. Elle me sera d'un grand secours dans cette île si j'y fixe mon séjour. Donnez-moi de vos nouvelles et de celles de M. Lénieps et de M. Coindet. Mademoiselle Levasseur, qui m'est venue joindre, vous fait ses salutations et vous réitère ses remerciements. En passant à Neuchâtel, elle a fait usage de la lettre de change qui lui est venue bien à propos. L'argent ne nous manque pas, mais où achète-t-on le repos Voilà la seule chose dont j'ai besoin et que je ne puis trouver. Bonjour, monsieur. À monsieur du Pérou, à Neuchâtel. À Lille, ce 17 octobre 1765. On me chasse d'ici mon cher hôte le climat de Berlin est trop rude pour moi je me détermine à passer en Angleterre où j'aurais dû d'abord aller j'aurais grand besoin de tenir conseil avec vous mais je ne puis aller à Neuchâtel voyez si vous pourriez par charité vous dérober à vos affaires pour faire un tour jusqu'ici je vous embrasse à monsieur de Grafenried bailli de Nido à l'île Saint-Pierre, le 20 octobre 1765. Monsieur, le triste état où je me trouve et la confiance que j'ai dans vos bontés me déterminent à vous supplier de vouloir bien faire agréer à leurs excellences une proposition qui tend à me délivrer une fois pour toutes des agitations que j'éprouve et qui va mieux, ce me semble, au but de ceux qui me poursuivent que ne fera mon éloignement j'ai consulté ma situation, mon âge, mon humeur, mes forces rien de tout cela ne me permet d'entreprendre en ce moment et sans préparation de longs et pénibles voyages, d'aller errant dans des pays froids, et de me fatiguer à chercher un asile dans une saison où mes infirmités ne me permettent pas même de sortir de la chambre. Après ce qui s'est passé, je ne puis me résoudre à rentrer dans le territoire de Neuchâtel, où la protection du prince et du gouvernement ne saurait me garantir des fureurs d'une populace excitée et qui ne connaît aucun frein. Et vous comprenez, monsieur, qu'aucun des États voisins ne voudra ou n'osera donner retraite à un malheureux si durement chassé de celui-ci dans cette extrémité, je ne vois pour moi qu'une seule ressource, et, quelque effrayante qu'elle paraisse, je la prendrai non seulement sans répugnance, mais avec empressement, si leurs excellences y veulent bien consentir c'est qu'il leur plaise que je passe en prison le reste de mes jours dans quelqu'un de leurs châteaux ou quelque autre lieu dans leurs états, qu'il leur semblera bon de choisir. J'y vivrai à mes dépens, et je donnerai sûreté de n'être jamais à leur charge. Je me soumets à n'avoir ni papier, ni plume, ni aucune communication au dehors, si ce n'est pour l'absolue nécessité, et par le canal de ceux qui seront chargés de moi. Seulement qu'on me laisse, avec l'usage de quelques livres, la liberté de me promener quelquefois dans un jardin, et je suis content. Ne croyez point, monsieur, qu'un expédient si violent en apparence soit le fruit du désespoir. J'ai l'esprit très calme en ce moment. Je me suis donné le temps d'y bien penser, et c'est d'après un sérieux examen de mon état que je m'y détermine. Considérez, je vous supplie, que si ce parti est extraordinaire, ma situation l'est encore plus. Mes malheurs sont sans exemple. La vie orageuse que je mène sans relâche depuis plusieurs années serait terrible pour un homme en santé, jugé ce qu'elle doit être pour un pauvre infirme, épuisé de maux et d'ennuis, et qui n'aspire qu'à mourir en paix. Toutes les passions sont éteintes dans mon cœur. Il n'y reste que l'ardent désir du repos et de la retraite. Je les trouverai dans l'habitation que je demande, à couvert des importuns et exempt de nouvelles catastrophes. J'attendrai tranquillement la dernière. Et n'étant plus instruit de ce qui se passe dans le monde, je ne serai plus attristé de rien. J'aime la liberté sans doute, mais la mienne n'est point au pouvoir des hommes, et ce ne seront ni des murs ni des clés qui me l'ôteront. Cette captivité, monsieur, me paraît si peu terrible. Je sens si bien que j'y jouirai de tout le bonheur que je peux espérer dans cette vie, que c'est par là même que, quoiqu'elles doivent délivrer mes ennemis de toute inquiétude de ma part, je n'ose espérer l'obtenir mais je ne veux rien avoir à me reprocher vis-à-vis -vis de moi, non plus que vis-à-vis d'autrui. Je veux pouvoir me rendre le témoignage que j'ai tenté tous les moyens praticables et honnêtes qui pouvaient m'assurer le repos et prévenir les nouveaux orages qu'on me force d'aller chercher. Je connais, monsieur, les sentiments d'humanité dont votre âme généreuse est remplie. Je sens tout ce qu'une grâce de cette espèce peut vous coûter à demander. Mais quand vous aurez compris que, vu ma situation, cette grâce en serait en effet une très grande pour moi, ces mêmes sentiments qui font votre répugnance me sont garants que vous saurez la surmonter. J'attends pour prendre définitivement mon parti qu'il vous plaise de m'honorer de quelques réponses. Daignez monsieur, je vous supplie, agréer mes excuses et mon respect. À Monsieur du Pérou, fin octobre 1765 Il est impossible que nul autre que moi déchiffre ces brouillons qui contiennent l'histoire de ma jeunesse jusqu'à mon départ pour Paris en 1741. Gardez-les toutefois. Si jamais nous nous revoyons, je pourrai les mettre au net. Sinon, vous en pourrez toujours tirer par ci par là quelques anecdotes qui vous expliqueront bien des choses du caractère de votre ami qui n'est connu de personne. Septième partie. L'exil. L'Angleterre. 1765-1767 À M. David Hume. Strasbourg, le 4 décembre 1765. Vos bontés, monsieur, me pénètrent autant qu'elles m'honorent. La plus digne réponse que je puisse faire à vos offres est de les accepter, et je les accepte. Je partirai dans cinq ou six jours pour aller me jeter entre vos bras. C'est le conseil de Milord Maréchal, mon protecteur, mon ami, mon père. C'est celui de Madame de Bouffler, dont la bienveillance éclairée me guide autant qu'elle me console. Enfin, j'ose dire, c'est celle de mon cœur, qui se plaît à devoir beaucoup aux plus illustres de mes contemporains, dont la bonté surpasse la gloire. Je soupire après une retraite solitaire et libre où je puisse finir mes jours en paix. Si vos soins bienfaisants me la procurent, je jouirai tout ensemble et du seul bien que mon cœur désire et du plaisir de le tenir de vous. Je vous salue, monsieur, de tout mon cœur. À Madame de Verdelin, à Wotton, le 9 avril 1766. C'est à regret, madame, que je vais affliger votre bon cœur, mais il faut absolument que vous connaissiez ce David Hume à qui vous m'avez livré, comptant me procurer un sort tranquille. Depuis notre arrivée en Angleterre où je ne connais personne que lui, quelqu'un qui est très au fait et fait toutes mes affaires, travaille en secret, mais sans relâche, à mi déshonoré et réussit avec un succès qui m'étonne. Tout ce qui vient de m'arriver en Suisse a été déguisé. Mon dernier voyage de Paris et l'accueil que j'y ai reçu ont été falsifiés. On a fait entendre que j'étais généralement méprisé et décrié en France pour ma mauvaise conduite et que c'est pour cela principalement que je n'osais m'y montrer. On a mis dans les papiers publics que, sans la protection de Monsieur Hume, je n'aurais osé dernièrement traverser la France pour m'embarquer à Calais, mais qu'il m'avait obtenu le passeport dont je m'étais servi on a traduit et imprimé comme authentique la fausse lettre du roi de Prusse, fabriquée par d'Alembert et répandue à Paris par leur ami commun Walpole. On a pris à tâche de me présenter à Londres avec mademoiselle Levasseur dans tous les jours qui pouvaient jeter sur moi du ridicule. On a fait supprimer, chez un libraire, une édition et traduction qui s'allait faire des lettres de monsieur du Pérou. Dans moins de six semaines, tous les papiers publics qui d'abord ne parlaient de moi qu'avec honneur ont changé de langage et n'en ont plus parlé qu'avec mépris la cour et le public ont de même rapidement changé sur mon compte et les gens surtout avec qui m hume a le plus de liaison sont ceux qui se distinguent par le mépris le plus marqué affectant pour l'amour de lui de vouloir me faire la charité plutôt qu'honnêteté sans le moindre témoignage d'affection ni d'estime et comme persuadé qu'il n'y a que des services d'argent qui soient à l'usage d'un homme comme moi Durant le voyage, il m'avait parlé du jongleur tronchin comme d'un homme qui avait fait près de lui des avances traîtresses et dont il était fondé à se défier. Il se trouve cependant qu'il loge à Londres avec le fils du dit jongleur, vit avec lui dans la plus grande intimité, et vient de le placer auprès de M. Michel, ministre à Berlin, où ce jeune homme va, sans doute chargé d'instruction qui me regarde. J'ai eu le malheur de loger deux jours chez M. Hume, dans cette même maison, venant de la campagne à Londres. Je ne puis vous exprimer à quel point la haine et le dédain se sont manifestés contre moi dans les hôtesses et les servantes, et de quel accueil infâme on y a régalé Mlle Levasseur. Enfin, Enfin, je suis presque assuré de reconnaître au ton haineux et méprisant tous les gens avec qui M. Hume vient d'avoir des conférences. Et je l'ai vu cent fois, même en ma présence, tenir indirectement les propos qui pouvaient le plus indisposer contre moi ceux à qui il parlait. Deviner quel est son but, c'est ce qui m'est difficile. D'autant plus qu'étant à sa discrétion et dans un pays dont j'ignore la langue, toutes mes lettres ont passé jusqu'ici par ses mains qu'il a toujours été très avide de les voir et de les avoir, que de celles que j'ai écrites peu sont parvenues, que presque toutes celles que j'ai reçues avaient été ouvertes, et celles d'où j'aurais pu tirer quelque éclaircissement probablement supprimées. Je ne dois pas oublier deux petites remarques. L'une, que le premier soir depuis notre départ de Paris, étant couchés tous trois dans la même chambre, j'entendis au milieu de la nuit David Hume s'écrier plusieurs fois à pleine voix Je tiens Jean-Jacques Rousseau Ce que je ne pus alors interpréter que favorablement. Cependant, il y avait dans le ton je ne sais quoi d'effrayant et de sinistre que je n'oublierai jamais la seconde remarque vient d'une espèce d'épanchement que j'eus avec lui après une autre occasion de lettre que je vais vous dire j'avais écrit le soir sur sa table à madame de chelonceau il était très inquiet de savoir ce que j'écrivais et ne pouvait presque s'abstenir d'y lire je ferme ma lettre sans la lui montrer il la demande avidement en disant qu'il l'enverra le lendemain par la poste il faut bien la donner elle reste sur sa table lord newnham arrive david sort un moment je ne sais pourquoi je reprends ma lettre en disant que j'aurai le temps de l'envoyer le lendemain milord newnham s'offre de l'envoyer par le paquet de l'ambassadeur de france j'accepte david rentre tandis que lord newnham fait son enveloppe il tire son cachet david offre le sien avec tant d'empressement qu'il faut s'en servir par préférence on sonne. Lord Newnham donne la lettre au domestique pour l'envoyer sur le champ chez l'ambassadeur. Je me dis en moi-même Je suis sûr que David va suivre le domestique. Il n'y manqua pas, et je parierais tout au monde que ma lettre n'a pas été rendue ou qu'elle avait été décachetée. À souper, il fixait alternativement sur Mlle Levasseur et sur moi des regards qui m'effrayèrent, et qu'un honnête homme n'est guère assez malheureux pour avoir reçu de la nature. Quand elle fut montée pour s'aller coucher dans le chenil qu'on lui avait destiné, nous restâmes quelque temps sans rien dire. Il me fixa de nouveau du même air. Je voulus essayer de le fixer à mon tour. Il me fut impossible de soutenir son affreux regard. Je sentis mon âme se troubler. J'étais dans une émotion horrible. Enfin, le remords de mal juger d'un si grand homme sur des apparences prévalues. Je me précipitais dans ses bras tout en larmes en m'écriant, non, David Hume n'est pas un traître, cela n'est pas possible. Et s'il n'était pas le meilleur des hommes, il faudrait qu'il en fût le plus noir. À cela, mon homme, au lieu de s'attendrir avec moi ou de se mettre en colère, au lieu de me demander des explications, reste tranquille, réponds à mes transports par quelques caresses froides en me frappant de petits coups sur le dos et s'écriant plusieurs fois Mon cher monsieur, quoi donc, mon cher monsieur J'avoue que cette manière de recevoir mon épanchement me frappa plus que tout le reste. Je partis le lendemain pour cette province où j'ai rassemblé de nouveaux faits, réfléchi, combiné et conclus en attendant que je meure. J'ai toutes mes facultés dans un bouleversement qui ne me permet pas de vous parler d'autre chose. Madame, ne vous rebutez pas par mes misères et daignez m'aimer encore, quoique le plus malheureux des hommes. J'ai vu le docteur Gatti en grande liaison avec notre homme, et deux seules entrevues m'ont appris certainement que, quoi que vous en puissiez dire, le docteur Gatti ne m'aime pas. Je dois vous avertir aussi que la boîte que vous m'avez envoyée par lui avait été ouverte et qu'on y avait mis un autre cachet que le vôtre. Il y a presque de quoi rire à penser combien mes curieux ont été punis. À Madame de luz Neuchâtel en Suisse, à Wotton le 10 mai 1766. Suis-je assez heureux, madame, pour que vous pensiez quelquefois à mes torts et pour que vous me sachiez mauvais gré d'un si long silence? J'en serais trop puni si vous n'y étiez pas sensible. Dans le tumulte d'une vie orageuse, combien j'ai regretté les douces heures que je passais près de vous? Combien de fois les premiers moments du repos après lequel je soupirais ont été consacrés d'avance au plaisir de vous écrire? J'ai maintenant celui de remplir cet engagement, et les agréments du lieu que j'habite m'invitent à m'y occuper de vous, madame, et de M. de Luz, qui m'en a fait trouver beaucoup à y venir. Quoique je n'ai point directement de ses nouvelles, j'ai su qu'il était arrivé à Paris en bonne santé, et j'espère qu'au moment où j'écris cette lettre, il est heureusement de retour auprès de vous. Quelque intérêt que je prenne à ses avantages, je ne puis m'empêcher de lui envier celui-là. Et je vous jure, madame, que cette paisible retraite perd pour moi beaucoup de son prix quand je songe qu'elle est à trois cents lieues de vous. Je voudrais vous la décrire avec tous ses charmes, afin de vous tenter, je n'ose dire de m'y venir voir, mais de la venir voir, et moi j'en profiterai. Figurez-vous, madame, une maison seule, non fort grande mais fort propre. Bâti à mi-côte sur le penchant d'un vallon dont la pente est assez interrompue pour laisser des promenades de plein pied sur la plus belle pelouse de l'univers. Au devant de la maison règne une grande terrasse d'où l'œil suit dans une demi-circonférence de quelques lieues un paysage formé de prairies, d'arbres, de fermes éparses, de maisons plus ornées et bordées en forme de bassin par des coteaux élevés qui bornent agréablement la vue quand elle ne pourrait aller au-delà. Au fond du vallon, qui sert à la fois de garenne et de pâturage, on entend murmurer un ruisseau qui, d'une montagne voisine, vient couler parallèlement à la maison, et dont les petits détours, les cascades, sont dans une telle direction que, des fenêtres et de la terrasse, l'œil peut assez longtemps suivre son cours. Le vallon est garni par place de rochers et d'arbres où l'on trouve des réduits délicieux et qui ne laissent pas de s'éloigner assez de temps en temps du ruisseau pour offrir sur ses bords des promenades commodes à l'abri des vents et même de la pluie, en sorte que par les plus vilains temps du monde, je vais tranquillement herboriser sous les roches avec les moutons et les lapins. Mais hélas, madame, je n'y trouve point de scordium. Au bout de la terrasse, à gauche, sont des bâtiments rustiques et le potager. À droite, sont les bosquets et un jet d'eau. Derrière la maison est un pré entouré d'une lisière de bois, laquelle, tournant au-delà du vallon, couronne le parc, si l'on peut donner ce nom, à une enceinte à laquelle on a laissé toutes les beautés de la nature. Ce pré mène, à travers un petit village qui dépend de la maison, à une montagne qui en est à une demi-lieue, et dans laquelle sont diverses mines de plomb que l'on exploite. Ajoutez qu'aux environs, on a le choix des promenades soit dans des prairies charmantes, soit dans des bois, soit dans des jardins à l'anglaise, moins peignés mais de meilleur goût que ceux des Français. La maison, quoique petite, est très logeable et bien distribuée. Il y a dans le milieu de la façade un avant-corps à l'anglaise, par lequel la chambre du maître de la maison et la mienne qui est au-dessus ont une vue de trois côtés. Son appartement est composé de plusieurs pièces sur le devant et d'un grand salon sur le derrière. Le mien est distribué de même, excepté que je n'occupe que deux chambres, entre lesquelles et le salon est une espèce de vestibule ou d'antichambre fort singulière, éclairée par une large lanterne de vitrage au milieu du toit. Avec cela, madame, je dois vous dire qu'on fait ici bonne chère à la mode du pays, c'est-à-dire simple et saine, précisément comme il me la faut. Le pays est humide et froid, ainsi les légumes ont peu de goût, le gibier aucun, mais la viande y est excellente, le laitage abondant et bon. Le maître de cette maison la trouve trop sauvage et s'y tient peu, il en a de plus riantes qu'il lui préfère et auxquelles je la préfère moi, par la même raison. J'y suis non seulement le maître, mais mon maître, ce qui est bien plus. Point de grand village aux environs, la ville la plus voisine en est à deux lieues, par conséquent peu de voisins désœuvrés. Sans le ministre qui m'a pris dans une affection singulière, je serai ici dix mois de l'année absolument seul. Que pensez vous de mon habitation, madame? La trouvez vous assez bien choisie, et ne croyez vous pas que pour en préférer une autre il faille être ou bien sage, ou bien fou? Eh bien, madame, il s'en prépare une plus loin du biais, plus près du tertre que je regretterai sans cesse et où, malgré l'envie, mon cœur habitera toujours. Je ne la regretterai pas moins quand celle-ci m'offrirait tous les autres biens possibles, excepté celui de vivre avec ses amis. Mais au reste, après vous avoir peint le beau côté, je ne veux pas vous dissimuler qu'il y en a d'autres, et que comme dans toutes les choses de la vie, les avantages y sont mêlés d'inconvénients. Ceux du climat sont grands. Il est tardif et froid. Le pays est beau, mais triste, la nature y est engourdie et paresseuse. À peine avons-nous déjà des violettes, les arbres n'ont encore aucune feuille, jamais on n'y entend de rossignol. Tous les signes du printemps disparaissent devant moi. Mais ne gâtons pas le tableau vrai que je viens de faire, il est pris dans le point de vue où je veux vous montrer ma demeure afin que vos idées s'y promènent avec plaisir. Ce n'est qu'auprès de vous, madame, que je pourrais trouver une société préférable à la solitude. Pour la former dans cette province, il y faudrait transporter votre famille entière, une partie de Neuchâtel et presque tout Hiverdon. Encore, après cela, comme l'homme est insatiable, me faudrait-il vos bois, vos monts, vos vignes, en, enfin tout, jusqu'au lac et ses poissons. Bonjour, madame. Mille tendres salutations à monsieur de Luz. Parlez quelquefois avec madame de Froment et madame Sandoz de ce pauvre exilé. Pourvu qu'il ne le soit jamais de vos cœurs, tout autre exil lui sera supportable. Mademoiselle Levasseur, pénétrée de vos bontés pour elle et pour moi, m'en parle sans cesse avec attendrissement et vous supplie d'agréer son respect. Si je ne vous ai pas écrit plus tôt, ce n'est assurément pas sa faute. Un fragment d'une lettre à monsieur le marquis de Mirabeau, vers le 25 mars 1767. Votre lettre monsieur du 20 février m'est parvenue assez promptement, et je puis vous assurer que les choses très agréables que j'y ai lues ne sont pourtant pas ce qui m'a fait le plus de plaisir. Mais ne vous attendez pas toutefois de ma part à une correspondance en règle. C'est un engagement que je ne veux pas prendre parce que je me sens hors d'état de le tenir même avec vous. Tout soin qu'il faut remplir me coûte et me pèse, par l'unique raison qu'il le faut. Mais j'ai particulièrement une telle aversion pour écrire des lettres que je ne me livre au plaisir de recevoir des gens que j'aime qu'après m'être assuré qu'ils n'exigent pas de réponse. Pour un si grand ennemi de l'injustice, je ne vous paraîtrai peut-être pas trop conséquent. Je crois pourtant l'être, car selon moi c'est une injustice aux autres de m'imposer, même à mon profit, une loi que je ne puis supporter. Et ce n'en est pas une à moi de me refuser à cette loi en renonçant, quoiqu'à regret, à ses avantages. Il est certain que vos lettres me plaisent et me font du bien, mais écrire me fait un mal extrême. Écrire est un devoir qui me tue. Je ne puis me soumettre à ce devoir que par la plus forte nécessité. Dans tous mes projets de béatitude temporelle, n'avoir ni montre ni écritoire a toujours été mon article favori. Si vous voulez porter jusqu'au bout la générosité que vous m'avez montrée, faites-moi du bien gratuitement. N'exigez point dans mes réponses plus d'exactitude que je n'y en puis mettre. Lorsqu'elle n'y sera pas, accusez-moi de négligence, non d'indifférence, vous auriez tort très assurément. Enfin, puisqu'il faut toujours que je sois en reste avec vous, ne marchandez pas sur le plus ou le moins, et passez de grâce la même inégalité dans le nombre et la mesure de nos lettres qu'il faut bien passer malgré vous et moi dans la valeur de leur contenu. Rien ne me fatigue tant que d'écrire si ce n'est que de penser et il me faudrait fatiguer un mois pour répondre à une de vos pages. N'exigez pas de moi à proportion de ce que vaut ce que vous m'écrivez, mais à proportion de ce qu'il vous coûte, et d'une page j'aurais payé dix de vos lettres, au lieu que par l'autre calcul, ce serait tout le contraire, et tout mon temps n'y suffirait pas. Vous voulez m'offrir, dites vous, une autre philosophie? De la philosophie? À moi? Eh, hey, monsieur le marquis, vous me faites un honneur que je ne mérite guère. Les systèmes de toute espèce sont trop au-dessus de moi. Je n'en mets aucun dans ma vie et dans ma conduite. Réfléchir, comparer, chicaner, persister, combattre n'est plus mon affaire. Je me laisse aller à l'impression du moment sans résistance et même sans scrupule, car je suis parfaitement sûr que mon cœur n'aime que ce qui est bien. Tout le mal que j'ai fait en ma vie, je l'ai fait par réflexion. Et le peu de bien que j'ai pu faire, je l'ai fait par impulsion. Cela fait que je me livre à mes penchants avec confiance. Ils sont si simples, si faciles à suivre. Pour les contenter, il en coûte si peu aux autres et à moi-même, qu'en vérité, c'est vouloir escrimer à toute force que de se roidir contre eux. Vous supposez que je fuis la société par aversion pour elle. Vous vous trompez dans les deux points. Je ne la hais ni ne la fuis. J'en hais la gêne qui s'y trouve, et je hais cette gêne mortellement. Sans elle, la société me serait agréable, mais la gêne l'empoisonne, et je renonce à un bien dont je peux me passer pour éviter un mal qui m'est insupportable. Les autres me disent qu'ils n'y trouvent pas cette gêne tant mieux pour eux, mais je l'y trouve, moi. Voulez-vous disputer sur un fait de sentiment et Il faut que je parle quand je n'ai rien à dire que je reste en place quand je voudrais marcher, assis quand je voudrais être debout, enfermé dans une chambre quand je soupire après le grand air, que j'aille ici quand je voudrais aller ailleurs, que je mange à l'heure des autres, que je marche de leurs pas, que je réponde à leurs compliments ou à leurs sarcasmes, que je réponde à des billets verts et rouges dont je n'entends pas un seul mot, que je raisonne avec les raisonneurs, que je suive le phébus des beaux esprits, que je dise des fadeurs aux femmes, enfin, que je fasse toute la journée tout ce que je sais le moins et qui me déplaît le plus, et que je ne fasse rien, je ne dis pas seulement de ce que je voudrais faire, mais de ce que la nature et les plus pressants besoins me demandent, à commencer par celui de pisser, plus fréquent et plus tourmentant pour moi qu'aucun autre. Je frémis encore à m'imaginer dans un cercle de femmes, forcé d'attendre qu'un beau diseur ait fini sa phrase, nous en sortir sans qu'on me demande si je m'en vais trouvant dans un escalier bien éclairé d'autres belles dames qui me regardent, une cour pleine de carrosses toujours en mouvement, prêts à m'écraser, des femmes de chambre qui me regardent, messieurs les laquais qui bordent les murs et se moquent de moi, ne trouvant pas une muraille, une voûte, un malheureux petit coin qui me convienne, ne pouvant en un mot pisser qu'en grand spectacle et sur quelques nobles jambes à bas blanc. Monsieur, quand il n'y aurait que ce seul article, il suffirait pour me faire prendre en horreur l'habitation d'une ville. Moi qui même déteste les plaines et cherche toujours les lieux fourrés et sombres pour pouvoir deux cents fois le jour m'arrêter à mon aise, à l'instant du besoin, sans être vu même des paysans, je me lève à l'heure qu'on se couche à Paris, je me couche avant qu'on y soupe, ma journée est presque finie avant qu'on y commence. Mon premier soin est d'aller errant en bonnet de nuit dans la campagne, je vais et viens, rentre et ressort à tous les quarts d'heure, je ne peux vivre que soubdillé, je ne respire qu'au milieu des prés et des bois, j'étouffe dans une chambre, dans une salle, dans une maison, dans une rue, dans la place Vendôme, le pavé, le gris des murs et des toits me donnent le cauchemar, et vous voulez que j'aille passer ma vie ou plutôt l'achever au milieu de tout cela? Et il faudra que j'en passe les trois meilleurs quarts encloîtrés dans cette triste, ou plutôt dans cette horrible prison, ne sachant que faire, que devenir, n'ayant que la ressource effroyable des livres, ou de la funeste écritoire. Ou bien il faudra qu'à soixante ans je renonce à mes vieilles habitudes pour m'en faire de toutes nouvelles, comme si je me portais assez bien pour soutenir un pareil changement, car avec les habitudes que j'ai prises et les goûts invincibles dont je me sens subjugué à mon âge, si la dure nécessité me rappelle jamais au séjour des villes, ce ne sera que pour m'y faire enterrer. Je consens fort que vous n'approuviez pas ma manière de vivre, pourvu que vous n'entrepreniez pas de m'en faire changer il n'y a point de raisonnement qui me puisse engager d'en prendre une autre tant que je sentirai que la mienne me convient. Je vous promets de chercher la société dès qu'elle me sera nécessaire jusque là permettez que je reste comme je suis. Moi je vous permets de tout mon cœur en échange de trouver que j'ai très grand tort. Je ne vous ai parlé jusqu'ici que du physique. Commençons toujours par examiner ce point, et nous passerons aux autres. Je n'ai besoin ni de votre bourse, ni de vos amis, ni de votre crédit, ni de votre savoir, ni presque de votre temps, et dans deux jours, dans vingt-quatre heures, vous pouvez être débarrassé de moi. J'ai besoin de votre âme vertueuse, de votre bon sens, de quelques soins faciles et simples, et du plus profond secret, voilà tout. Et avec cela, vous pouvez assurer la paix des derniers jours d'un infortuné qui met en vous seul toute son espérance. Je ne suis point homme à vous importuner de mes lamentations. Je n'ai à vous parler ni de malheurs, ni de mes ennemis, ni de leurs complots, ni de personne au monde que de moi seul. Tout ce que j'ai à vous dire est l'affaire d'une minute. Mais je n'en suis plus aux essais, je les ai faits, j'en suis maintenant au résultat, et je m'y tiens. Ah, Monsieur Davenport Wotton, le 30 avril 1767. Un maître de maison, monsieur, est obligé de savoir ce qui se passe dans la sienne, surtout à l'égard des étrangers qu'il y reçoit. Si vous ignorez ce qui se passe dans la vôtre à mon égard, depuis Noël, vous avez tort. Mais le tort le moins excusable est d'avoir oublié votre promesse et d'être allé tranquillement vous établir à Davenport, sans vous embarrasser si l'homme qui vous attendait ici sur votre parole y était à son aise ou non. En voilà plus qu'il ne faut pour me faire prendre mon parti. Demain, monsieur, je quitte votre maison. J'y laisse mon petit équipage et celui de Mademoiselle Levasseur, et je laisse le produit de mes estampes et livres pour sûreté des frais faits pour ma dépense depuis Noël. Je n'ignore ni les embûches qui m'attendent, ni l'impuissance où je suis de m'en garantir. Mais, monsieur, j'ai vécu. Il ne me reste qu'à finir avec courage une carrière passée avec honneur. Il est aisé de m'opprimer, mais difficile de m'avilir. Voilà ce qui me rassure contre les dangers que je vais courir. Recevez de rechef mes vifs et sincères remerciements de la noble hospitalité que vous m'avez accordée. Si elle avait fini comme elle a commencé, j'emporterai de vous un souvenir bien tendre, qui ne s'effacerait jamais dans mon cœur. Adieu, monsieur, je regretterai souvent la demeure que je quitte, mais je regretterai beaucoup davantage d'avoir eu un hôte aussi aimable et de n'en avoir pu faire mon ami. Je laisse chez vous trois malles pleines auxquelles les clés sont attachées. Je laisse sur la commode de la petite chambre les livres qui vont à la masse de l'acquisition faite par monsieur Dutens. La plupart, bouquins qui ne valent pas le transport, mais dont quelques-uns sont assez bons pour racheter l'inutilité du reste. Sur la tablette du milieu de l'armoire aux livres qui est dans la chambre de mademoiselle Levasseur, sont mes livres de botanique qui auraient besoin d'une petite caisse prise sur leur mesure. Sur la tablette au-dessous, dans la même armoire, est un recueil de musique choisie, où, si Mlle Davenport cultive cet art, elle trouvera des choses excellentes, et que je la supplie de conserver en mémoire de moi. J'ai remis dans la caisse des livres de M. Davenport ceux qu'il avait eu la bonté de me prêter. To Richard Davenport, Esquire, at Wootton, Ashburnbag, Derbyshire. Turn at Stilton, a spelding in Lincolnshire. Le 11 mai 1767, lundi. Vous devez être offensé, monsieur, mais vous avez assez d'entrailles pour cesser de l'être quand vous songerez à mon sort. Je préférerais la liberté au séjour de votre maison. Ce sentiment est bien excusable. Mais je préfère infiniment le séjour de votre maison à toute autre captivité. Et je préférerais toute autre captivité à celle où je suis, qui est horrible, et qui, quoi qu'il arrive, ne saurait durer. Si vous voulez bien, monsieur, me recevoir de rechef chez vous, je suis prêt à m'y rendre au cas qu'on m'en laisse la liberté. Et quand j'y serai, après l'expérience que j'ai faite, difficilement serais-je tenté d'en ressortir pour chercher de nouveaux malheurs. Si ma proposition vous agrée, tâchez, monsieur, de me le faire savoir par quelque voie sûre et de faciliter mon retour d'ici chez vous. Si vous ne faites que m'écrire par la poste, votre lettre me parviendra d'autant moins que je suis logé chez le maître de poste. J'attends votre réponse avec impatience, moins pour moi, je vous l'avoue, dont le cœur est mort désormais à tout plaisir, mais pour l'infortunée compagne de ma destinée, dont le sort me fait frémir d'horreur, si venant à me perdre elle reste ici seule et abandonnée, au lieu qu'en me perdant chez vous, il lui reste au moins un appui, car je vous connais trop pour craindre que vous l'abandonniez en pareil cas. Je ne vous en dirai pas davantage, monsieur, mais je lâche cette lettre, doutant si elle vous parviendra. Un monsieur le Général Conway, Douvres vers le 18 ou le 19 mai 1767 Monsieur, j'ose vous supplier de vouloir bien prendre sur vos affaires le temps de lire cette lettre seule et avec attention. C'est à votre jugement éclairé, c'est à votre âme saine que j'ai à parler. Je suis sûr de trouver en vous tout ce qu'il faut pour peser avec sagesse et avec équité ce que j'ai à vous dire. J'en serai moins sûr si vous consultez tout autre que vous. J'ignore avec quel projet j'ai été amené en Angleterre. Il y en a eu un, cela est certain, j'en juge par son effet, aussi grand, aussi plein qu'il aurait pu l'être, quand ce projet eût été une affaire d'État. Mais comment le sort, la réputation d'un pauvre infortuné pourrait-il jamais faire une affaire d'État C'est ce qui est trop peu concevable pour que je puisse m'arrêter à pareille supposition. Cependant que les hommes les plus élevés, les plus distingués, les plus estimables qu'une nation tout entière se prêtent aux passions d'un particulier qui veut en avilir un autre, c'est ce qui se conçoit encore moins. Je vois les faits, la cause m'est cachée, et je me suis tourmenté vainement pour la pénétrer, mais quelle que soit cette cause, les suites en seront les mêmes, et c'est de ces suites qu'il s'agit ici. Je laisse le passé dans son obscurité, c'est maintenant l'avenir que j'examine j'ai été traité dans mon honneur aussi cruellement qu'il soit possible de l'être ma diffamation est telle en angleterre que rien ne l'y peut relever de mon vivant je prévois cependant ce qui doit arriver après ma mort par la seule force de la vérité et sans qu'aucun écrit posthume de ma part s'en mêle mais cela viendra lentement et seulement quand les révolutions du gouvernement auront mis tous les faits passés en évidence alors ma mémoire sera réhabilitée mais de mon vivant, je ne gagnerai rien à cela. Vous concevez, monsieur, que cette ignominie intolérable au cœur d'un homme d'honneur rend au mien le séjour de l'Angleterre insupportable. Mais on ne veut pas que j'en sorte, je le sens, j'en ai mille preuves, et cet arrangement est très naturel. On ne doit pas me laisser aller publier au dehors les outrages que j'ai reçus dans l'île, ni la captivité dans laquelle j'ai vécu. On ne veut pas non plus que mes mémoires passent dans le continent et ailleurs instruire une autre génération des maux que m'a fait souffrir celle ci. Quand je dis on, j'entends les premiers auteurs de mes disgrâces. À Dieu ne plaise que l'idée que j'ai, monsieur, de votre respectable caractère ne me permette jamais de penser que vous ayez trempé dans le fond du projet. Vous ne me connaissez point. On vous a fait croire de moi beaucoup de choses, L'illusion de l'amitié vous a prévenu pour mes ennemis. Ils ont abusé de votre bienveillance et, par une suite de mon malheur ordinaire, les nobles sentiments de votre cœur, qui vous auraient parlé pour moi si j'eusse été mieux connu de vous, m'ont nuit par l'opinion qu'on vous en a donnée. Maintenant, le mal est sans remède. Il est presque impossible que vous soyez désabusé. C'est ce que je ne suis pas à portée de tenter, et dans l'erreur où vous êtes, la prudence veut que vous vous prêtiez aux mesures de mes ennemis. J'oserais pourtant vous faire une proposition qui, je crois, doit parler également à votre cœur et à votre sagesse. La terrible extrémité où je suis réduit en fait, je l'avoue, ma seule ressource. Mais cette ressource en est peut-être également une pour mes ennemis contre les suites désagréables que peut avoir pour eux mon dernier désespoir. Je veux sortir, monsieur, de l'Angleterre ou de la vie, et je sens bien que je n'ai pas le choix. Les manœuvres sinistres que je vois m'annoncent le sort qui m'attend si je feins seulement de vouloir m'embarquer. J'y suis déterminé pourtant, parce que toutes les horreurs de la mort n'ont rien de comparable à celles qui m'environnent. Objet de la risée et de l'exécration publique, je ne me vois environné que des signes affreux qui m'annoncent ma destinée. C'est trop souffrir, monsieur, et toute interdiction de correspondance m'annonce assez que, sitôt que l'argent qui me reste sera dépensé, je n'ai plus qu'à mourir. Dans ma situation, ce sera un soulagement pour moi, et c'est le seul désormais qui me reste, mais j'ai bien de la peine à penser que mon malheur ne laisse après lui nulle trace désagréable. Quelque habilement que la chose ait été concertée, quelque droite qu'en soit l'exécution, il restera des indices peu favorables à l'hospitalité nationale. Je suis malheureusement trop connu pour que ma fin tragique ou ma disparition demeure sans commentaire, et, qu'en tant de complices garderaient le secret, tous mes malheurs précédents mettront trop de gens sur la trace de celui-ci, pour que les ennemis de mes ennemis, car tout le monde en a, n'en fasse pas quelques jours un usage qui pourrait leur déplaire. On ne sait jusqu'où ces choses-là peuvent aller, et l'on n'est plus maître de les arrêter quand une fois elles marchent. Convenez, monsieur, qu'il y aurait quelque avantage à pouvoir se dispenser d'en venir à cette extrémité. Or, on le peut, et prudemment on le doit, Daignez m'écouter. Jusqu'à présent, j'ai toujours pensé à laisser après moi des mémoires qui misent au fait la postérité des vrais événements de ma vie. Je les ai commencés, déposés en d'autres mains, et désormais abandonnés. Ce dernier coup m'a fait sentir l'impossibilité d'exécuter ce dessin et m'en a totalement ôté l'envie. Je suis sans espoir, sans projet sans désir même de rétablir ma réputation détruite, parce que je sais qu'après moi cela viendra de soi-même, et qu'il me faudrait des efforts immenses pour y parvenir de mon vivant. Le découragement m'a gagné, la douce amitié, l'amour du repos sont les seules passions qui me restent, et je n'aspire qu'à finir paisiblement mes jours dans le sein d'un ami. Je ne vois plus d'autre bonheur pour moi sur la terre, et quand j'aurai désormais à choisir, je sacrifierai tout à cet unique désir qui m'est resté. Voilà, monsieur l'homme qui vous propose de le laisser aller en paix, et qui vous engage sa foi, sa parole, tous les sentiments d'honneur dont il fait profession, et toutes ses espérances sacrées qui font ici-bas la consolation des malheureux, que non seulement il abandonne pour toujours le projet d'écrire sa vie et ses mémoires, mais qu'il ne lui échappera jamais, ni de bouche ni par écrit, un seul mot de plainte sur les malheurs qui lui sont arrivés en Angleterre, qu'il ne parlera jamais de monsieur Hume, ou qu'il n'en parlera qu'avec honneur, et que lorsqu'il sera pressé de s'expliquer sur les plaintes indiscrètes, qui dans le fort de ses peines lui sont quelquefois échappées, il les rejettera sans mystère sur son humeur aigrie et portée à la défiance et aux ombrages par des malheurs continuels. Je pourrais parler de la sorte avec vérité, n'ayant que trop d'injustes soupçons à me reprocher par ce malheureux penchant, ouvrage de mes désastres, et qui, maintenant, y met le comble. Je m'engage solennellement à ne jamais écrire quoi que ce puisse être, et sous quelque prétexte que ce soit, pour être imprimé ou publié, ni sous mon nom, ni en anonyme, ni de mon vivant, ni après ma mort. Vous trouverez, monsieur, ces promesses bien fortes. Elles ne le sont pas trop pour la détresse où je suis. Vous me demanderez des garants pour leur exécution. Euh, cela est très juste. Les voici. Je vous prie de les peser. Premièrement tous mes papiers relatifs à l'Angleterre y sont encore dans un dépôt. Je les ferai tous remettre entre vos mains, et j'y en ajouterai quelques autres assez importants qui sont restés dans les miennes. Je partirai avide et sans autre papier qu'un petit portefeuille absolument nécessaire à mes affaires, et que j'offre à visiter. Secondement, vous aurez cette lettre signée pour garant de ma parole, et de plus, une autre déclaration que je remettrai en partant, à qui vous me prescrirez, est telle que, si j'étais capable de jamais l'enfreindre de mon vivant, ou après ma mort, cette seule pièce anéantirait tout ce que je pourrais dire en montrant dans son auteur un infâme qui, se jouant de ses promesses les plus solennelles, ne mérite d'être écouté sur rien. Ainsi, mon travail, détruisant son propre objet, rendrait la peine aussi ridicule que vaine. En. Troisième lieu, je suis prêt à recevoir toujours, avec le même respect et la même reconnaissance, la pension dont il plaît au roi de m'honorer. Or, je vous demande, monsieur, si lorsqu'honoré d'une pension du prince, j'étais assez vil, assez infâme pour mal parler de son gouvernement, de sa nation et de ses sujets, il serait possible en aucun temps qu'on m'écoutât sans indignation, sans mépris et sans horreur. Monsieur, je me lis par les liens les plus forts et les plus indissolubles. Vous ne pouvez pas supposer que je veuille rétablir mon honneur par des moyens qui me rendraient le plus vil des mortels. Il y a, monsieur, un quatrième garant, plus sûr, plus sacré que tous les autres, et qui vous répond de moi. C'est mon caractère, connu pendant cinquante et six ans, esclave de ma foi, fidèle à ma parole, si j'étais capable de gloire encore, je m'en ferais une illustre et fière de tenir plus que je n'aurais promis. Mais plus concentré dans moi même, il me suffit d'avoir en cela la conscience de mon devoir. Eh, monsieur, pouvez vous penser que, de l'humeur dont je suis, je puisse aimer la vie en portant la bassesse et le remords dans ma solitude? Quand la droiture cessera de m'être chère, c'est alors que je serai vraiment mort au bonheur. Non, monsieur. Je renonce pour jamais à tout souvenir pénible. Mes malheurs n'ont rien d'assez amusant pour les rappeler avec plaisir. Je suis assez heureux si je suis libre et que je puisse rendre mon dernier soupir dans le sein d'un ami. Je ne vous promets en ceci que ce que je me promets à moi-même si je puis goûter encore quelques jours de paix avant ma mort. Je n'ai parlé jusqu'ici, monsieur, qu'à votre raison. Je n'ai qu'un mot maintenant à dire. À votre cœur. Vous voyez un malheureux réduit au désespoir, n'attendant plus que la manière de sa dernière heure. Vous pouvez rappeler cet infortuné à la vie, vous pouvez vous en rendre le sauveur, et du plus misérable des hommes en faire encore le plus heureux. Je ne vous en dirai pas davantage, si ce n'est ce dernier mot qui vaut la peine d'être répété, je vois mon heure extrême qui se prépare je suis résolu, s'il le faut, de l'aller chercher et de périr ou d'être libre. Il n'y a plus de milieu. Huitième partie La vie cachée Tri, Bourgoin, Monquin 1767 1770 à Monsieur le marquis de Mirabeau, ce vendredi 19 juin 1767 je lirai votre livre, puisque vous le voulez. Ensuite, j'aurai à vous remercier de l'avoir lu, mais il ne résultera rien de plus de cette lecture que la confirmation des sentiments que vous m'avez inspirés et de mon admiration pour votre grand et profond génie, ce que je me permets de vous dire en passant et seulement une fois. Je ne vous réponds pas même de vous suivre toujours, parce qu'il m'a toujours été pénible de penser, fatigant de suivre les pensées des autres, et qu'à présent, je ne le puis plus du tout. Je ne vous remercie point, mais je sors de votre maison fier d'y avoir été admis et plus désireux que jamais de conserver les bontés et l'amitié du maître. Du reste, quelque mal que vous pensiez de la sensibilité prise pour toute nourriture, c'est l'unique qui m'est restée. Je ne vis plus que par le cœur. Je veux vous aimer autant que je vous respecte. C'est beaucoup. Mais voilà tout. N'attendez jamais de moi rien de plus. J'emporterai, si je puis, votre livre de plantes. S'il m'embarrasse trop, je le laisserai, dans l'espoir de revenir quelques jours, le lire plus à mon aise. Adieu, mon cher et respectable hôte. Je pars plein de vous et content de moi puisque j'emporte votre estime et votre amitié. À M. Coindet, hôtel Leblanc, rue de Cléry, à Paris à Gisors le 27 juin au soir 1767. Je suis venu ici, cher Coindet, au devant de mon chien, avec monsieur Cochois, à qui j'assurais bien en venant qu'infailliblement il serait arrivé malheur au pauvre animal, et qui se moquait de moi comme de raison. Le carrosse arrive, on interroge le cocher, qui daigne à peine nous écouter, et qui, dit-il, n'a point de chien. On le presse, on importune, là, il l'a, dit-il, oublié à Pontoise. Tel a été le sort final du malheureux sultan. Et tel est le mien en toute chose. Adieu. À M. Coindet, à l'hôtel Leblanc, rue de Cléry, à Paris, ce 28 juin 1767. Je me hâte de vous dire qu'on vient de ramener mon chien. J'en suis redevable à la précaution que vous avez prise, et que j'ignorais, de faire graver sur son collier le nom du château. J'ai reçu aussi votre envoi. Je vous remercie de tout et vous embrasse de tout mon cœur. Renou. Je signe exprès mon nom afin que vous ne mettiez plus le T dont vous nous gratifiez à l'insu de nos ancêtres et qui, s'il passait contre l'orthographe de nos titres, serait capable de plonger dans la roture l'ancienne et illustre maison de Renou. À Madame la Marquise de Verdelin, au château de Trie, le 22 juillet 1767. Que je vous plains, Madame, connaissant si bien votre cœur de mère, de voir toujours par les rechutes d'une fille chérie, tromper l'attente du succès de vos soins pour sa guérison. N'ayez plus cette attente si souvent et si cruellement trompée. Vos soins ne se relâcheront pas, mais leur inutilité vous tourmentera moins. Il y a, quoi qu'on en dise, des situations, où l'espérance même est cruelle, et où c'est une sorte de repos de n'en avoir plus. Je sens cette sorte de repos, madame, tâchez de l'avoir de même à cet égard, et qu'il soit à jamais le seul où ce triste remède puisse être à votre usage. Tous les détails que votre excellent cœur vous dicte, madame, sur l'établissement champêtre dont vous me donnez le projet, et dont vous voulez si généreusement me faciliter l'exécution, sont autant de jouissances anticipées sur ma reconnaissance. Mais en vérité, je suis rebuté pour jamais de tout projet et ne veux plus vivre qu'au jour la journée. Les choses de la vie ne valent pas les soins qu'elles nous coûtent et, pour moi, je suis déterminé à les laisser aller désormais leur train naturel à mon égard. Au tournant des malheurs qui m'entraînent, je ne veux pas joindre celui d'y vouloir résister. Que les coups de la dure nécessité me frappent à leur aise, je ne daignerai pas sortir de ma place pour leur échapper. J'en éprouve ici des plus pénibles auxquels je m'étais le moins attendu, car, honoré des bontés et de la protection du maître de cette maison, je n'imaginais guère que je serais livré au dédain de ses valets et aux insultes tant de la canaille qui les suit que de celles qu'ils ameutent. Il m'est impossible d'imaginer quelle main donne le premier branle à tout cela, mais il est certain qu'il y en a une. Je vois dans le détail quelques causes, mais qui ne me paraissent pas proportionnées aux effets. La première est mon équipage et celui de ma sœur, un peu moins que bourgeois. Dans un protégé du prince, traité avec tant de distinction, l'on s'attendait à voir un homme à grands airs, du galon, des rubans noirs ou rouges, un plumet, du moins une épée. Imaginez, madame, à quel point ma figure a dû frapper des gens pleins de tout cela. Ils ont cru que le prince se moquait d'eux et qu'il leur envoyait quelques faquins d'espions pour examiner leur conduite. Et vous concevez qu'ils ne sont pas curieux de cet examen. Quand on m'a vu aller seul herborisant dans les bois, je suis devenu un faiseur d'orvietan dont le prince s'était angoué parce qu'il lui promettait la pierre philosophale, et comme on s'attend à me voir au premier jour chassé ignominieusement, on croit faire d'avance la cour à son altesse en prévenant obligeamment ce soin de sa part. Le commandant de l'équipage de chasse, homme oh, à ce qu'on dit très haut et très vain, paraît outré de me voir occuper un appartement qu'il aurait peut-être voulu pour lui même, et surtout de savoir qu'il ne tient qu'à moi d'aller à la chasse et à la pêche, grâce dont vous croyez que je n'ai pas abusé. Deux jours après mon arrivée est venu ici un nouveau concierge, qui dès l'abord s'est montré fort mal disposé pour moi, soit que mon voisinage l'incommode, soit qu'il trouve mauvais que je n'ai point été mis dans sa dépendance, soit, comme on le prétend, qu'il me croit placé ici par madame de Boufflère, dont il ose parler sur un ton à mériter une punition exemplaire. Cet homme est à la tête de ceux qui se flattent de me faire sortir d'ici à force de désagréments. Il m'a même fait enfermer plusieurs fois, tantôt hors du château, tantôt dedans, et il a fallu que l'officier du prince, pour éviter à l'avenir le même inconvénient, fît faire une autre clé du château pour moi. Le jardinier qui a eu l'ordre de me fournir des légumes l'a trouvé fort mauvaise, m'a fait insulter par ses garçons conjointement avec les palefreniers, valets de chiens et autres gens dont je ne connais pas un seul. Ils ont soulevé contre moi tout le village et les villages voisins. Le vicaire s'émite la partie. Je ne saurais faire un pas dans le château ni dehors sans y recevoir quelques marques de dédain et de malveillance. L'officier du prince a fait mettre en prison un garçon jardinier pour lequel j'ai voulu intercéder. L'officier n'a pas paru content de me voir ainsi compter sur mon crédit. Il m'a dit que si je voulais être protégé, il fallait le laisser faire. Et, sentant l'importance dont il est pour moi de ne pas indisposer le seul homme sous la sauvegarde duquel je suis au milieu de tant d'ennemis, je l'ai laissé. Et je le laisserai faire sans plus me mêler de rien. Grâce au ciel, monsieur le prince de Conti va revenir. L'équipage et sa suite vont retourner à l'île Adam. Et je puis espérer de rester ici un peu plus tranquille. Mais, tranquille ou non, je suis bien déterminé à demeurer quoi qu'il arrive et à ne point sortir d'ici à moins que je n'en sois tout à fait chassé. Il n'est pas possible que Son Altesse ignore absolument ce qui s'est passé, et je suis sûr que pour peu qu'elle en sache, elle sera indignée et y mettra ordre pour l'avenir. Mais le public, qui, quand les malheurs me viennent chercher, dit toujours que c'est moi qui les cherche, ne manquera pas de dire, aussi sagement qu'à son ordinaire, que je ne puis rester en repos nulle part, ce qui ne serait que trop vrai s'il voulait dire qu'en quelque lieu que je me réfugie, on ne me laisse en repos nulle part. Au reste, comme je disais d'abord, les causes que je viens d'exposer ne suffisent pas pour expliquer ce qui se passe, car il paraît, par la contenance de ceux dont j'aurais à me plaindre, qu'ils ne craignent rien, et que quand même on ferait contre eux des plaintes, ils sont très sûrs de l'impunité. Ce qui me semble annoncer qu'il se sentent appuyé en secret de quelqu'un qui a du crédit. Voilà, madame, à quoi je ne comprends rien. Quoi qu'il en soit, j'attends et mets tout au pied. L'ancienne habitude d'une confiance qui vous peut devenir importune, mais qui m'est toujours douce, vous attire, madame, ces longs verbiages. Je vous supplie de les pardonner à la cause qui les produit. Vous m'exhortez d'écrire à Monsieur Davenport pour le tirer de l'inquiétude où il est sur mon sort et qui dites-vous le rend malade. On vous trompe, madame, sur ces deux points. Le mal qui retient monsieur Davenport dans sa chambre est la goutte, à laquelle je n'ai certainement aucune part, et il n'a pu avoir aucune inquiétude par l'incertitude de ce que j'étais devenu, puisque depuis mon départ d'auprès de lui jusqu'à mon arrivée ici, je lui ai écrit deux ou trois fois toutes les semaines, et que j'ai reçu moi-même de ses lettres assez souvent pour être assuré que toutes les miennes lui étaient parvenues. Ainsi, madame, je vous supplie et vous conseille de vous fier un peu moins sur ce qui me regarde à la bonne foi des correspondants que vous pouvez avoir dans ce pays-là. Mes hommages, je vous supplie, aux trois grâces et à leur mère. Mon adresse est à M. Manouri, lieutenant des chasses de son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince de Conti, pour remettre à M. Renou, au château de Tri, par Gisors. Au Prince de Conti, à Tri, le 19 novembre 1767. Pardonnez, monseigneur, mes longues importunités. Il convient que vous sachiez ce qui se passe ici, ou du moins ce que j'en sais moi-même. Je ne ferai que narrer, je contiendrai les élans d'indignation qui m'étouffent. Votre Altesse sérénissime a pu connaître dans quelle disposition j'attendais monsieur du Pérou. Le moment où je l'embrassais me donna la plus pure et la plus vive joie que j'ai jamais sentie, et d'autant plus vive que j'osais à peine y compter. J'avais toujours craint qu'on apportât quelque obstacle à sa venue. Je connais mes ennemis, je sais ce qu'ils savent faire. Il savait que Monsieur Dupérou était dépositaire de tous mes papiers, de tous mes secrets, de tous mes projets. Il n'ignorait pas que celui d'aller finir mes jours avec lui était le projet favori de mon cœur. Il savait que je ne pouvais rien faire sans lui. Son voyage en Hollande excitait leur attention. Il supposait, et bien faussement, je le jure, qu'il était chargé de ma part de quelque affaire avec Ray. Tout cela me faisait présumer qu'il ne me laisserait pas jouir tranquillement de cette entrevue je ne prévoyais pas qu'au lieu d'y porter obstacle, il saurait en tirer parti. Il arriva très affaibli d'une longue convalescence, mais passablement remis d'une attaque de goutte qu'il avait eue à Paris, laquelle n'avait pas été si bien décidée qu'à l'ordinaire et n'avait pas aussi nettement fini. En quittant les extrémités, elle avait reparu à la hanche, à l'épaule. Presque en même temps, il avait eu la grippe qui n'avait pas eu non plus son progrès et qu'il avait un peu brusqué pour venir plus tôt ici. On lui avait fait prendre des bouillons préparés, du petit lait, des purgatifs qui lui avaient affaibli l'estomac, on lui avait fait faire dans les oreilles des injections d'esprit d'urine, mêlées peut-être d'autres drogues, qu'il continuait à mon insu et qui pouvaient à la longue offenser son cerveau. Il passa huit à dix jours avec moi, gai, mangeant bien, dormant bien, reprenant journellement ses forces, prenant beaucoup plus de café que je n'aurais voulu, et n'ayant d'autre incommodité que quelques légères coliques qu'il attribuait à l'eau que nous buvions, et quelques légers ressentiments de gouttes auxquels il faisait peu d'attention. Un matin, j'appris qu'il avait passé une très mauvaise nuit sans dormir, et dans des agitations continuelles. Quand il vint pour déjeuner, il avait un visage de déterré. Il ne put achever sa tasse. Il nous montra sa main droite un peu enflée et nous dit que son pied l'était aussi. Je lui trouvais de la fièvre. Il me proposa d'aller prendre l'air espérant que cela se dissiperait. J'y consentis. À peine pouvait-il mettre un pied devant l'autre. Il était d'un assoupissement si profond qu'il s'asseyait ou plutôt s'y laissait tomber sous chaque arbre qu'il rencontrait et s'y endormait à l'instant. Cet assoupissement m'effraya plus encore que l'abattement et la fièvre. Je le crus menacé d'une attaque d'apoplexie, et après l'avoir ramené non sans peine, je lui fis prendre dans un grand verre d'eau une cuillerée d'eau d'écarme, dont je bus aussi pour l'encourager. La fièvre et l'assoupissement continuèrent sans autres accidents. Je crus alors, ainsi que lui, que c'était une espèce de courbature venue de trop fortes marches et telle que j'en avais eu quelquefois. Il resta deux jours dans cet état, après quoi le sommeil, le quittant tout à coup, fit place à la plus opiniâtre insomnie, accompagnée de continuelles agitations, durant lesquelles il s'occupait des échecs auxquels nous avions joué tout l'après-midi qui précéda la nuit qu'il tomba malade. Il se sentit mal à la gorge, à la tête, à l'estomac, de l'oppression. Sa main et son pied étaient désenflés, mais il sentait des douleurs dans les genoux. Je jugeais que sa goutte, effarouchée par les drogues qu'il avait prises, était errante et menaçait de remonter. Je le lui dis. Il n'en crut rien. Il soutint que tout son mal venait de sa grippe négligée. Peu d'accord sur la nature du mal, nous l'étions au moins que le traitement qu'on lui avait fait à Paris, mal à propos, avait occasionné cette rechute. Et nous nous étions bien promis de ne consulter aucun médecin. Son état cependant devenait pressant. Il ne buvait depuis plusieurs jours que de l'eau panée. La suffocation augmentait. Je proposais la moutarde sous les pieds. Il la rejeta. Je vis même que cette proposition l'indisposait, et son domestique augmentait sa répugnance en exagérant les douleurs de cette application. À force de me dire que je prenais le change sur la cause de son mal, il semblait m'accuser d'un aveuglement volontaire. Je ne compris rien à cette accusation, sinon que la fièvre le faisait extravaguer. Au défaut de la moutarde qu'il refusait, je lui fis mettre les pieds dans de l'eau tiède. Après cela, je tâchais de le faire suer. J'y parvins une fois, et j'excitais souvent une moiteur salutaire. La fièvre diminua. La douleur au genou augmenta, et il y vint un peu d'enflure. Mais l'estomac souffrait toujours. Le malade commença à s'inquiéter extrêmement et d'une façon extraordinaire. Il parlait sans cesse des mauvais levains qu'il disait être dans son estomac. Ses regards, son air, ses mots entrecoupés avaient quelque chose de si étrange que, m'en alarmant enfin tout de bon, je résolus d'en pénétrer le mystère. Que devins-je quand, à force de l'examiner, de le presser, de le conjurer d'expliquer son silence obstiné, je parvins à comprendre qu'il se croyait empoisonné et par qui Mon Dieu. J'ai toujours cru qu'il y avait des sortes de délires qui ne pouvaient jamais entrer dans la tête d'un honnête homme, fût-il devenu fou. Et ce n'est pas surtout dans des têtes aussi bien organisées et vivifiées par un cœur aussi sain que j'ai toujours cru le sien que de tels délires peuvent prendre de la consistance. Je cherchais d'abord hors de lui la source d'une opinion où par sa nature et ma position, l'on ne sait lequel domine de l'atrocité, de l'absurdité ou de l'impossibilité même, puisque M. Dupérou, depuis le moment de son arrivée jusqu'à celui où il est tombé malade, n'a rien mangé ni rien bu chez moi, quoi que ce puisse être dont nous n'ayons mangé et bu avec lui. J'examinai plus attentivement son domestique dont le patelinage m'avait toujours déplu, et bientôt je ne doutais plus que ce ne fût lui qui tournait la tête à son maître. J'avais prévu depuis longtemps qu'on cherchait à séduire les domestiques de mon ami pour tâcher d'intercepter par eux nos lettres et de parvenir à visiter mes papiers dès son arrivée je l'avais prié d'y veiller lorsqu'il serait de retour chez lui depuis sa maladie les frayeurs affectées de ce garçon son air effaré son langage extraordinaire sa défiance apparente l'intimité secrète qui s'établit tout à coup entre lui et son maître peu liant d'ordinaire avec ses gens tout m'apprit que mes premiers soupçons n'étaient que trop bien fondés mais comment s'y était-il pris pour fasciner à ce point la raison d'un homme sage? Que lui avait-il dit? Sur quels indices s'était-il fondé? C'est ce que je m'efforçais vainement de pénétrer. Sentant de quelle importance il était pour la guérison de mon ami de le tranquilliser, de lui ôter ses noires et folles idées, je n'épargnais rien pour l'engager à m'ouvrir son cœur, à m'expliquer la cause d'une défiance aussi extravagante, à me mettre à portée de l'en guérir, à me dire au moins nettement qu'il se défiait de moi je ne vis que ces dangers j'oubliais toute la fierté de l'amour-propre si justement indigné je fis parler le sentiment la vérité la vertu dans leur ton le plus énergique je le conjurai dans les plus tendres effusions de mon âme d'épancher la sienne avec moi tout fut inutile Sourd à la plus touchante voix du sentiment et de l'amitié, il ne me fit que des réponses obscures, équivoques, trompeuses, faussement négatives et que démentaient ses regards et son air. Du Pérou est froid et concentré. Je le savais et ne l'en estimais pas moins. Je le croyais au fond très sensible. Je me trompais, puisqu'il ne fut point ému de mes angoisses, il ne le sera jamais de rien. Hors d'état de percer par là le mystère, je tentais de sonder son valet. Je lui dis quelques mots assez clairs qu'il feignit de ne pas comprendre. J'y revins, en examinant sa contenance. Il ne sourcilla pas. Je crus voir dans ses yeux cette imperturbable assurance des scélérats, qui ressemble à la simplicité de l'innocence, et, gémissant de douleur, je me vis forcé de renoncer à percer ce ténébreux mystère. Je résolus alors de faire appeler un médecin, et j'en prévins le malade, qui continuait de s'y opposer, craignant extrêmement d'être subjugué et drogué. Mais comme il le fallait absolument, j'insistais, promettant de ne laisser faire que ce qu'il approuverait lui-même, et par un billet que je lui montrais, je demandais moins le médecin qui raisonnait le mieux que celui qui entendait le mieux raison. Le médecin ne put venir que le lendemain matin. Il ne le trouva pas si mal qu'il croyait l'être et que son laquais le disait partout. Je lui détaillais tout ce que je crus nécessaire pour le mettre au fait du tempérament et de l'état présent du malade, et je n'oubliais pas de lui dire qu'il croyait que des levains vénéneux étaient la cause de son mal. Il l'examina soigneusement, le questionna, palpa les parties souffrantes, décida que son mal n'était autre qu'une goutte remontée, et en conséquence ordonna l'application de la moutarde pour laquelle j'avais vainement insisté. La moutarde commença à opérer. Les pieds enflèrent, la fièvre baissa encore, mais la faiblesse augmenta au point d'alarmer presque le médecin. Le malade, toujours préoccupé de ses noires idées et sentant le siège de son mal dans l'estomac, laissait avec un sourire moqueur appliquer et renouveler la moutarde, mais il ne cessait de dire qu'on prenait le change et me demanda des fomentations sur l'estomac. Je le dis au médecin, ajoutant qu'en effet, si l'on pouvait renforcer l'estomac pour en chasser l'humeur, tandis qu'on l'attirait au pied, l'effet m'en paraissait devoir être et plus sûr et plus prompt. Le médecin goûta cet avis, mais au lieu d'un topique que demandait le malade, il ordonna une potion cordiale et antispasmodique qu'on apporta quelque temps après. J'étais alors seul avec le malade ayant envoyé coucher son domestique qui avait passé la nuit auprès de lui. La potion devait être distribuée en plusieurs prises. Je voulus moi-même les lui donner. La couleur en était grise, un peu noirâtre, et le blanc de la tasse faisant paraître la liqueur encore plus noire. Cette couleur le frappa extrêmement. Il me dit en me fixant et prenant la tasse Je la prends avec bien de la confiance. Je vis à son air combien il mentait. Ce regard me déchira. Mon âme, à la fois navrée, indignée et élevée, était prête à s'enflammer. Je me contins, mais, sentant l'horreur de mon sort et la noblesse de mon rôle, je me vis à la place du médecin Philippe, et je lui dis d'un ton qui seul l'eût désabusé s'il avait su lire ⁇ Oui, mon excellent ami, ayez la confiance d'Alexandre et je vous promets que vous en aurez le succès. ⁇ Il but malheureusement il se trouva de la poudre précipitée au fond de la tasse l'aspect de cette poudre acheva de l'effaroucher je le pressai de tout boire il le fit se laissa tomber sur son chevet et s'endormit à l'instant daignez monseigneur vous mettre un moment à ma place et juger de mon état assis à son chevet plus mourant que lui je notais pas les yeux de dessus son visage. Je comptais les battements de son pouls, les reprises de sa respiration, les secondes que durait son sommeil. Il dormit ou parut dormir longtemps, et c'était la première fois depuis son insomnie. Je ne savais si je devais me féliciter ou m'effrayer de ce long somme. Je saisis des moments de réveil pour lui faire prendre les autres prises à leur heure. Il les prenait et s'assoupissait de nouveau. Il y avait dans la potion des gouttes anodines d'Offman, mais j'étais sûr de la dose. Le malade prit successivement à peu près tout et continua de sommeiller. Le médecin vint le soir et le trouva beaucoup mieux. J'en jugeais de même. Il s'obstina à se trouver beaucoup plus mal et son domestique parlait comme lui. Enfin, l'air de désespoir que je vis autour de moi, les mots cruels et entrecoupés du maître, les accablantes exclamations du valet me troublèrent et l'emportèrent sur la certitude que me donnait son visage et son pouls de son meilleur état. L'effroi, le frémissement, la douleur de perdre en lui tout ce qui m'attachait encore à la vie, les terribles circonstances de cette perte, tout cela me tourna la tête et me mit tout à fait hors de moi. Je me précipitais sur mon ami, collant mon visage sur le sien, l'inondant de mes pleurs et poussant des cris à demi étouffés. Je ne sais ce que je lui dis dans mon transport, mais je sais très certainement que le plus ardent de mes voeux était de pouvoir expirer à l'instant même. Quel effet croiriez-vous, monseigneur, que fit tout cela sur son esprit rampant et préoccupé Le barbare m'osa reprocher que je choisissais l'instant de sa plus grande faiblesse pour lui donner une commotion qu'il acheva. Cette indignité fit enfin l'effet que tout le reste n'avait pu faire. En ce moment, je sentis toute mon estime, tout mon attachement, toute ma tendresse pour lui s'éteindre jusqu'à la dernière étincelle. Dès lors, je ne l'ai plus regardé que comme une âme basse, et mon cœur ne se sent pour lui que les sentiments qu'il lui doit. Je n'avais jusqu'alors pensé qu'à lui. Dès lors, je ne pensais plus qu'à moi. J'ai fait depuis tout par devoir, par humanité, par vertu, rien par amitié et sans me relâcher en rien. J'ai vu cet homme injuste et dur, insensible à mes infatigables soins, à ceux de ma sœur, aux alarmes, aux angoisses, aux embarras de toute espèce, dont deux personnes seules sont surchargées par le maître et par le valet, s'exempter de toute sensibilité, de toute attention, de toute reconnaissance, par une opinion non moins extravagante qu'horrible, qui ne saurait même être sincère, et que l'ingratitude seule a pu nourrir en lui, pour se dispenser de sentir qu'il me doit la vie. Plein de tout ce qui venait de se passer, et toujours plus effrayé du manège du valet qui semblait n'attendre à chaque instant que le dernier soupir de son maître, j'en vins dans ma terreur jusqu'à craindre que ce malheureux ne commît lui même le crime qu'il semblait vouloir m'imputer, et ce noir soupçon prit tout à coup une si grande force, que je résolus de rester toujours auprès du malade et de veiller sur tout ce qu'il lui ferait prendre je restai jusqu'à minuit dans sa chambre, persistant dans cette résolution et l'exécutant. Cependant je ne tardais pas à sentir mon injustice et à en rougir. Convaincu que cet homme est un fourbe, mais non pas un empoisonneur, je me reprocherais toujours d'avoir pu soupçonner un valet d'un forfait abominable dont mon ami n'a pas craint d'accuser dans son cœur son ami. Tandis que ces cruelles idées me tourmentaient, ce valet, quoique persuadé à ce qu'il disait que le malade allait mourir, ne laissait pas d'écrire à Paris à son camarade de lui envoyer par le carrosse qui devait venir dans six jours du linge et des hardes pour leur maître, et bien inquiet de savoir ses papiers chez son baigneur, quoique bien enfermé dans des tiroirs dans sa chambre et gardé par l'autre laquais, il balançait à lui envoyer les clés de ses tiroirs à l'insu de leur maître pour prendre ses papiers et les transporter chez un ami. Il me tint là-dessus les propos les plus singuliers, cherchant à me faire approuver cette expédition, ce que je me gardais de faire. Je crus voir que ces deux drôles auraient bien voulu visiter les papiers de leur maître, selon les instructions de ceux qui les employaient. Ne pouvant rien obtenir de moi, il prit son parti de lui même, et j'ai su qu'il écrivait à son camarade de transporter les papiers sans dire comment, ce que celui ci n'osa faire au moyen d'une fracture, l'autre n'ayant osé envoyer les clés. J'ai jugé de ce qu'il écrivait à mon égard par ce qui est arrivé dans la suite, c'est tout ce que j'en puis savoir. La continuation de l'assoupissement vrai ou affecté du malade fut telle que je pris la précaution de m'emparer de la fiole où était le reste de la potion. Je la cachetai de son cachet, j'en fis autant d'une petite fiole de liqueur anodine qui était aussi là, et après avoir dit au valet de mettre le cachet dans sa poche, j'emportai chez moi les deux fioles. Quelques heures après, le valet vint me redemander la liqueur anodine, disant que son maître était agité et ne pouvait dormir. Je la refusai. Je lui dis qu'après un si long assoupissement, je ne voyais pas que le sommeil fût pour lui une chose si pressée et qu'il fallait attendre le médecin. Je passai la nuit à délibérer sur ce que j'avais à faire et sur ce que je me devais en pareille occasion. Je commençais à chercher un papier cacheté qu'il m'avait envoyé en Angleterre pour sûreté de ses engagements en cas de mort. Sur le dos de ce papier que je n'avais point ouvert, j'écrivis et signai une déclaration que je renonçais à toute part dans les biens de Monsieur du Pérou, à quelque titre que ce fût, que je me déclarais le dernier des infâmes si je n'acceptais jamais rien. Je voulus lui envoyer ce papier sur le champ. Mademoiselle Renou me représenta qu'il m'accuserait encore d'avoir voulu lui donner le dernier coup par cet envoi. J'attendis le matin qu'il était plus calme. La certitude seule qu'il n'était point en danger me permit ce court délai, car je n'aurais pu supporter qu'il n'eût pas de son vivant la preuve de la fausseté des indignes vues qu'il avait la bassesse de me prêter. Ma sœur, lui ayant porté le papier, me rapporta qu'en le recevant, il lui avait demandé affectueusement de mes nouvelles et me pressa fortement de passer chez lui. C'est ce que j'avais résolu de ne plus faire. Je m'étais aperçu que ma vue le faisait souffrir, et la scène de la veille m'avait rendu la sienne peu agréable. J'étais déterminé à ne plus rentrer chez lui. Elle me fit renoncer, non sans peine, à ce projet extravagant. J'y rentrai enfin. Je le trouvai presque sans fièvre, et beaucoup mieux que je m'y attendais. Cette potion si terrible, jointe à la moutarde réitérée, avait dégagé l'estomac, les pieds étaient considérablement enflés, il s'obstinait si bien à n'en vouloir rien croire que pour l'en convaincre il fallut les lui montrer dans un miroir. Alors il se retrancha à dire que ce n'était pas la goutte, parce qu'il n'y sentait point de douleur, et deux jours après, comme je fis percer des vessies que la moutarde avait faites, il demanda de quelle couleur était l'eau, et si elle n'était pas bien puante. On lui dit qu'elle était roussâtre et qu'elle ne sentait rien. Il n'en revenait pas. Cette fatale nuit, la plus terrible de ma vie, et dans le détail de laquelle j'ai cru devoir entrer, fut celle du lundi 9 au mardi 10 de ce mois. Le mardi matin, retrouvant, comme j'ai dit, le malade tranquille par son état, mais toujours agité par ses sombres idées, je fis mes derniers efforts pour l'en guérir. Je ne pris plus le ton tendre et touchant du sentiment. Cela m'eût été impossible, mais je pris celui du plus simple bon sens et de la plus solide raison qu'il devait du moins entendre. Je lui dis que les crimes abominables et périlleux ne se commettaient pas sans de grandes vues, et qu'il n'y en pouvait avoir que de petites et d'ineptes à celui qu'il imaginait. Je lui prouvais, ce qu'il savait aussi bien que moi, qu'en le perdant, je perdais tout, que tous mes projets se rapportaient à lui seul, comme à leur instrument et comme à leur terme, qu'en lui seul, après Votre Altesse, était ma dernière ressource, mon seul espoir pour finir mes jours en sécurité et en liberté, que d'ailleurs, je ne pouvais espérer de jouir en paix des conditions de notre traité, que de son vivant, que quelques mesures qu'il le prises, il, prise, il n'était pas possible qu'après sa mort, je n'eusse à essuyer de la part de ses héritiers des difficultés que, dans ma position, j'étais hors d'état de suivre et de vaincre, tandis que, lui vivant, je jouissais tranquillement et sans le moindre embarras qu'enfin le sort de mes papiers, qui tous étaient entre ses mains, était en quelque sorte attaché au sien, qu'après lui je n'en pouvais plus disposer ni savoir même ce qu'il deviendrait, qu'il y avait tout à parier qu'il finirait par tomber dans les mains de mes ennemis, et que cette idée, fût elle seule, me rendait sa conservation plus précieuse que la mienne propre. Un homme sensé pouvait il supposer que, pour le prix du plus exécrable de tous les crimes, je me fusse uniquement proposé, contre tous mes plus grands intérêts, de m'emparer de quelques effets qu'il pouvait avoir avec lui? Pouvait il me croire assez stupide, assez bête, pour ne pas voir l'impossibilité d'exécuter impunément un si sot projet, à l'insu de sa famille et de mes alentours, sous les yeux de son domestique qui savait le compte de tout, qui tenait tout, sans que jamais j'eusse mis l'œil ni la main sur rien? Quand même le scellé n'aurait pas été mis, était ce environné de surveillants, de malveillants attentifs à chercher l'occasion de me nuire, exacts à m'espionner, surtout dans de pareils instants, que sans avoir un seul homme de confiance, je pouvais espérer de soustraire la moindre chose secrètement. Forcé d'insister sur l'absurdité d'une supposition pareille, faute de pouvoir découvrir sur quel fondement il avait pu la bâtir, je le pressais de me mettre à portée de me justifier plus positivement, ne pouvant imaginer d'aucun côté le moindre indice qui pût lui rendre son ami suspect. Je lui montrais le plus fortement qu'il me fut possible le sacré devoir de ne condamner personne sans l'entendre, surtout en pareil cas, surtout un honnête homme et surtout son ami. Rien. Je n'obtins rien, pas un seul mot, sinon la certitude qu'il ne voulait ni m'entendre, ni s'expliquer, qu'il voulait se complaire dans son affreux délire, sans jamais laisser paraître la moindre trace des erreurs qu'il y avait conduit. Comme il m'avait reproché les fusions de cœur de la veille, il me reprocha le renvoi du papier comme fait dans la même vue. Il me faisait autant de nouveaux crimes de tous mes efforts pour le désabuser. Ce reproche ne me toucha plus. Je lui dis froidement que mon seul repentir était d'avoir reçu ce papier, ou de ne l'avoir pas forcé de le reprendre. Quant à Fleury, je voulus déjà le lui restituer. Vous m'avez fait, ajoutai-je, de ce prompt renvoi un devoir indispensable. S'il a été fait si tôt ou si tard, ne vous en prenez qu'à vous. Ennuyé sans doute de mes raisons et ne sachant qui répondre, il prit le parti de dormir ou d'en faire le semblant. Tandis qu'il avait les yeux fermés, je vis ses tresses altérées, son visage prendre une figure difforme et presque hideuse, je jugeais de ce qui se passait dans cette âme faible, troublée par l'effroi de la mort. Alors j'élevai la mienne au ciel, je me résignais dans les mains de la Providence, et je lui remis le soin de ma justification, bien résolu de ne plus m'avilir jusqu'à entrer en explication sur mon innocence avec un forcené. Toujours persuadé qu'il allait mourir, il guérissait cependant à vue d'œil, et pour ainsi dire malgré lui. La fièvre le quitta tout à fait, le sommeil revint, et cet appétit aussi mal réglé que la tête du malade me donna encore plus de peine à gouverner. On dirait qu'il est en quelque sorte fâché de guérir, et que la honte de ses torts lui donne du regret de s'en convaincre. Voyant que la mort ne venait pas comme il l'attendait, il crut avoir pris un poison lent qui le ferait languir quelque temps encore, et parce qu'il ne guérissait pas tout d'un coup, il crut ne jamais guérir. Ses mains étaient engourdies par l'humeur de goutte, rechassées aux extrémités. Il se crut impotent pour le reste de sa vie, et me le dit plusieurs fois. Les mains se dégagèrent, mais il lui restait un mal de gorge, il crut le garder toujours. Le mal de gorge cessé, il avait encore un peu de roideur dans les mâchoires. Il la regarda comme un effet permanent du venin. La roideur dissipée, il suintait quelque humeur des vessies ouvertes à ses pieds par la moutarde. Cette humeur, nourrie par le poison, devait, selon lui, couler toujours. Elle est tarie et les pieds sont tout à fait secs et désenflés. Je ne sais plus ce qu'il fera désormais, se sentant totalement guéri, cherchant du poison partout et n'en trouvant nulle part. Je commence à craindre que sa tête tout à fait altérée ne se remette jamais bien. Quelque effet qu'ait produit sur mon cœur son révoltant délire, j'ai suspendu de me décider sur son compte jusqu'à son parfait rétablissement, et je le lui ai dit, n'étant pas juste de juger irrévocablement un homme et un ami sur ce qu'il dit et fait dans la fièvre. Mais s'il se borne à être confus de sa folie et à vouloir l'oublier sans la réparer, tout est dit pour jamais entre lui et moi. S'il fait ce qu'il doit, je puis être encore s'il veut son ami, mais non pas son redevable. Quoi qu'il fasse, et dans quelque situation que je me trouve. Si jamais je me voyais forcé de recourir à l'assistance de quelque homme, j'aimerais mieux la recevoir du bourreau que de lui. Enfin, si l'objet de mes ennemis a été de nous détacher l'un de l'autre, j'avoue avec douleur qu'ils ont parfaitement réussi. Ah. Monseigneur, que les hommes savent peu ce qu'ils désirent. J'aurais payé de bon cœur des trois quarts des jours qui me restent à vivre le plaisir de voir ici monsieur du Pérou, et je les donnerais aujourd'hui de meilleur cœur encore pour qu'il n'y fût jamais venu. Voilà, monseigneur, ce que je sais, et que je ne puis expliquer qu'en supposant ce domestique venu avec des intentions sinistres et de l'adresse pour saisir l'occasion de les exécuter. J'ignore ce qu'il a pu écrire à Paris. Dès le commencement de l'attaque de M. Pérou, j'écrivis chez lui à Neuchâtel et à Paris à une de ses amies, et je continuais à lui donner des nouvelles du malade quand je vis arriver, il y a quelque temps, un express de la part de cette dame avec une lettre pour M. Pérou et aucune pour moi. L'express demanda M. Pérou sans aucune mention de M. Renou. Il me vit et ne me parla pas. Il s'attendait à trouver le malade mort. Il fut bien surpris de le trouver debout, causant avec moi au coin du feu. Le valet qui est ici, ayant reçu à Gisors réponse de son camarade qui est à Paris, et craignant peut-être d'être obligé de montrer cette réponse, s'est pressé de dire qu'il l'avait perdue en chemin. Huit ou dix jours après, cette réponse, ou une autre qu'il avait eu le temps d'y substituer, s'est retrouvée. Peut-être l'avait-il laissé tomber en lieu apparent pour la répandre sans affectation dans le pays. J'ignore ce qu'elle contient. Quoique le convalescent me paraisse très bien à présent et que malgré ses folies j'espère achever de le rétablir en dépit de lui, tant qu'il se gouvernera aussi mal, j'ai toujours à craindre quelque rechute. Si malheureusement elle arrivait, je supplie très instamment Votre Altesse Sérénissime de donner des ordres pour qu'en cas d'accident, tout se passe en règle que le scellé soit mis sur les effets de M. du Pérou, sur les miens, et surtout que le valet ne s'en retourne pas tranquillement chez lui, jusqu'à ce que l'affaire soit bien éclaircie. À euh, M. d'Ivernois, négociant à Genève. À Tri, le 29 janvier 1768. J'ai reçu, mon digne ami, votre paquet du 22. Et il me serait également parvenu sous l'adresse que je vous ai donnée quand vous n'auriez pas pris l'inutile précaution de la double enveloppe, sous laquelle il n'est même pas à propos que le nom de votre ami paraisse en aucune façon. C'est avec le plus sensible plaisir que j'ai enfin appris de vos nouvelles. Mais j'ai été vivement ému de l'envoi de votre famille à Lausanne. Cela m'apprend assez à quelle extrémité votre pauvre ville, et tant de braves gens dont elle est pleine, sont à la veille d'être réduits. Tout persuadé que je sois que rien ici-bas ne mérite d'être acheté au prix du sang humain, et qu'il n'y a plus de liberté sur la terre que dans le cœur de l'homme juste, je sens bien toutefois qu'il est naturel à des gens de courage qui ont vécu libre de préférer une mort honorable à la plus dure servitude. Cependant même dans le cas le plus clair de la juste défense de vous même, la certitude où je suis, qu'eussiez-vous pour un moment l'avantage, vos malheurs n'en seraient ensuite que plus grands et plus sûrs, me prouve qu'en tout état de cause, les voies de fait ne peuvent jamais vous tirer de la situation critique où vous êtes qu'en aggravant vos malheurs. Puis donc que, perdu de toute façon, Supposez qu'on ose pousser la chose à l'extrême, vous êtes prêt à vous ensevelir sous les ruines de la patrie, faites plus, osez vivre pour sa gloire au moment qu'elle n'existera plus. Oui, messieurs, il vous reste dans le cas que je suppose un dernier parti à prendre, et c'est, j'ose le dire, le seul qui soit digne de vous. C'est, au lieu de souiller vos mains dans le sang de vos compatriotes, de leur abandonner ces murs qui devaient être l'asile de la liberté et qui vont n'être plus qu'un repère de tyrans. C'est d'en sortir tous tous ensemble, en plein jour, vos femmes et vos enfants au milieu de vous, et puisqu'il faut porter des fers, d'aller porter du moins ceux de quelques grands princes, et non pas l'insupportable et odieux joug de vos égaux. Et ne vous imaginez pas qu'en pareil cas vous resteriez sans asile. Vous ne savez pas quelle estime et quel respect votre courage, votre modération, votre sagesse ont inspiré pour vous dans toute l'Europe. Je n'imagine pas qu'il s'y trouve aucun souverain, je n'en excepte aucun qui ne reçut avec honneur, j'ose dire avec respect, cette colonie émigrante d'hommes trop vertueux pour ne savoir pas être sujets aussi fidèles qu'ils furent et les citoyens. Je comprends bien qu'en pareil cas, plusieurs d'entre vous seraient ruinés, mais je pense que les gens qui savent sacrifier leur vie au devoir sauraient sacrifier leur bien à l'honneur et s'applaudir de ce sacrifice. Et qu'après tout, ceci n'est qu'un dernier expédient pour conserver sa vertu et son innocence quand tout le reste est perdu. Le cœur plein de cette idée, je ne me pardonnerai pas de n'avoir osé vous la communiquer. Du reste, vous êtes éclairé et sage. Je suis très sûr que vous prendrez toujours en tout le meilleur parti. Et je ne puis croire qu'on laisse jamais aller les choses au point qu'il est bon d'avoir prévu d'avance pour être prêt à tout événement. Si vos affaires vous laissent quelques moments à donner à d'autres choses qui ne sont rien moins que pressées, en voici une qui me tient au cœur, et sur laquelle je voudrais vous prier de prendre quelque éclaircissement dans quelqu'un des voyages que je suppose que vous ferez à Lausanne tandis que votre famille y sera. Vous savez que j'ai à Nyon une tante qui m'a élevée, et que j'ai toujours tendrement aimée, quoique j'ai une fois, comme vous pouvez vous en souvenir, sacrifié le plaisir de la voir à l'empressement d'aller avec vous joindre nos amis. Elle est fort vieille. Elle soigne un mari fort vieux. J'ai peur qu'elle n'ait plus de peine que son âge ne comporte et je voudrais lui aider à payer une servante pour la soulager. Malheureusement, quoique je n'ai augmenté ni mon train ni ma cuisine et que je n'ai aucun domestique à mes gages et que je sois ici logé et chauffé gratuitement, ma position me rend la vie ici si dispendieuse que ma pension me suffit à peine pour les dépenses inévitables dont je suis chargé. Voyez, cher ami, si cent francs de France par an pourraient jeter quelques douceurs dans la vie de ma pauvre vieille tante, et si vous pourriez les lui faire accepter. En ce cas, la première année courrait depuis le commencement de celle-ci, et vous pourriez la tirer sur moi d'avance, aussitôt que vous aurez arrangé cette petite affaire-là. Mais je vous conjure de voir que cet argent soit employé selon sa destination, et non pas au profit de parents ou voisins âpres qui souvent obsèdent les vieilles gens. Pardon, cher ami, je choisis bien mal mon temps, mais il se peut qu'il n'y en ait pas à perdre. Je recevrai toujours avec plaisir de vos nouvelles, et je présume qu'elles me parviendront sûrement. Cependant, il convient par prudence que nous ne nous, nous écrivions que quand il sera nécessaire, afin que notre correspondance, toute innocente qu'elle est, n'excite l'attention de personne. Lorsque vous serez dans le cas de votre voyage en Normandie, souvenez vous de tout ce que je vous recommandais pour celui d'Angleterre. C'est le même cas et sans exception pour plus de sûreté. Je vous embrasse de tout mon cœur, Mademoiselle Renou est très touchée de votre souvenir et vous salue mille fois. À Monsieur le Prince de Conti, très le Château, 18 juin 1768. Monseigneur, ceux qui composent votre maison, je n'en excepte personne, sont peu faits pour me connaître soit qu'ils me prennent pour un espion soit qu'ils me croient honnête homme tous doivent également craindre mes regards aussi monseigneur ils n'ont rien épargné et ils n'épargneront rien chacun par les manœuvres qui leur conviennent pour me rendre haïssable et méprisable à tous les yeux et pour me forcer de sortir enfin de votre château monseigneur en cela je dois et je veux leur complaire les grâces dont m'a comblé Votre Altesse sérénissime suffisent pour me consoler de tous les malheurs qui m'attendent en sortant de cet asile où la gloire et l'opprobre ont partagé mon séjour. Ma vie et mon cœur sont à vous, mais mon honneur est à moi. Permettez que j'obéisse à sa voix qui crie et que je sorte dès demain de chez vous. J'ose dire que vous le devez. Ne laissez pas un coquin de mon espèce parmi ces honnêtes gens. Monsieur du Pérou, Lyon, le 20 juin 1768. Je ne me pardonnerai pas, mon cher hôte, de vous laisser ignorer mes marches ou les apprendre par d'autres avant moi. Je suis à Lyon depuis deux jours, rendu des fatigues de la diligence, ayant grand besoin d'un peu de repos, et très empressé d'y recevoir de vos nouvelles, d'autant plus que le trouble qui règne dans le pays où vous vivez me tient en peine, et pour vous, et pour nombre d'honnêtes gens auxquels je prends intérêt. J'attends de vos nouvelles avec l'impatience de l'amitié. Donnez-m'en, je vous prie, le plus tôt que vous pourrez. Le désir de faire diversion à tant d'attristants souvenirs qui, à force d'affecter mon cœur, altéraient ma tête, m'a fait prendre le parti de chercher dans un peu de voyage et d'herborisation les amusements et distractions dont j'avais besoin. Et, le patron de la case ayant approuvé cette idée, je l'ai suivi. J'apporte avec moi mon herbier et quelques livres avec lesquels je me propose de faire quelques pèlerinages de botanique. Je souhaiterais, mon cher hôte, que la relation de mes trouvailles pût contribuer à vous amuser j'en aurai encore plus de plaisir à les faire. Je vous dirai, par exemple, qu'étant allé hier voir madame Bois de la Tour à sa campagne, j'ai trouvé dans sa vigne beaucoup d'aristoloches que je n'avais jamais vus et qu'au premier coup d'œil j'ai reconnus avec transport. Adieu, mon cher hôte, je vous embrasse et j'attends dans votre première lettre de bonnes nouvelles de vos yeux. À Mademoiselle Levasseur, sous le nom de Mademoiselle Renou, Grenoble, ce 25 juillet 1768, à trois heures du matin. Dans une heure d'ici, cher ami, je partirai pour Chambéry, muni de bons passeports et de la protection des puissances, mais non pas du sauf-conduit des philosophes que vous savez. Si mon voyage se fait heureusement, je compte être ici de retour avant la fin de la semaine et je vous écrirai sur le champ. Si vous ne recevez pas dans huit jours de mes nouvelles, n'en attendez plus et disposez de vous à l'aide des protections en qui vous savez que j'ai toute confiance et qui ne vous abandonneront pas. Vous savez où sont les effets, en quoi consistaient nos dernières ressources. Tout est à vous. Je suis certain que les gens d'honneur qui en sont dépositaires ne tromperont point mes intentions ni mes espérances. Pesez bien toutes choses avant de prendre un parti. Consultez Madame Labesse. Elle est bienfaisante, éclairée. Elle nous aime, elle vous conseillera bien. Mais je doute qu'elle vous conseille de rester auprès d'elle. Ce n'est pas dans une communauté qu'on trouve la liberté ni la paix. Vous êtes accoutumés à l'une, vous avez besoin de l'autre. Pour être libre et tranquille, soyez chez vous et ne vous laissez subjuguer par personne. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de venir à Lyon. Voyez l'aimable Madelon. Demeurez non chez elle, mais auprès d'elle. Cette excellente fille a rempli de tout point mon pronostic. Elle n'avait pas quinze ans que j'avais hautement annoncé quelle femme et quelle mère elle serait un jour. Elle l'est maintenant, et grâce au ciel, si solidement et avec si peu d'éclat, que sa mère, son mari, ses frères, ses sœurs, tous ses proches ne se doutent pas eux-mêmes du profond respect qu'ils lui portent, et croient ne faire que l'aimer de tout leur cœur. Aimez-la comme ils font, cher ami. Elle en est digne et vous le rendra bien. Tout ce qu'il restait de vertu sur la terre semble s'être réfugié dans vos deux cœurs. Souvenez-vous de votre ami l'une et l'autre, parlez-en quelquefois entre vous, puisse ma mémoire vous être toujours chère et mourir parmi les hommes avec la dernière des deux. Depuis mon départ de Tri, j'ai des preuves de jour en jour plus certaines que l'œil vigilant de la malveillance ne me quitte pas d'un pas et m'attend principalement sur la frontière. Selon le parti qu'ils pourront prendre, ils me feront peut-être du bien sans le vouloir. Mon principal objet est bien, dans ce petit voyage, d'aller sur la tombe de cette tendre mère que vous avez connue pleurer le malheur que j'ai eu de lui survivre. Mais il y a aussi, je l'avoue, du désir de donner si beau jeu à mes ennemis qu'ils jouent enfin de leur reste, car vivre sans cesse en tournée de leurs satellites flagorneurs et fourbes est un état pour moi pire que la mort. Si toutefois mon attente et mes conjectures me trompent, et que je revienne comme je suis allé, vous savez, chère sœur, chère amie, qu'ennuyé, dégoûté de la vie, je n'y cherchais et n'y trouvais plus d'autre plaisir que de chercher à vous la rendre agréable et douce. Dans ce qui peut m'en rester encore, je ne changerai ni d'occupation ni de goût. Adieu, chère sœur, je vous embrasse en frère et en ami. À Madame de Lesser, née Bois de la Tour, à Lyon, à Bourgoin, fin août 1769. Je me hâte, chère cousine, de vous apprendre que ma sœur, par la grâce du prince, est devenue ma femme, par la grâce de Dieu. Je ne remplis jamais aucun devoir de meilleur cœur, ni plus librement, puisque je ne lui en avais jamais donné la moindre espérance, et que deux minutes auparavant, elle n'avait aucun soupçon de ce que je voulais faire. Nous avons eu l'un et l'autre la douceur de voir les deux hommes de mérite que j'avais choisis pour témoins de cet engagement fondre en larmes au moment qu'il a été contracté. Je ne devais pas moins à celle pour qui un attachement de vingt cinq ans n'a fait qu'augmenter continuellement mon estime et qui s'est déterminée à partager tous les malheurs qu'on m'apprête pour ne se pas séparer de moi. Puisqu'elle ne veut pas me quitter, je veux du moins qu'elle me suive avec honneur. Cher ami, j'approuve d'autant moins la course que vous avez faite avec elle dans votre état et dont elle m'a parlé qu'avec les plus grandes alarmes pour votre santé, qu'elle même en est malade et qu'elle ne s'est pas trouvée bien un seul moment depuis son arrivée ici. Au reste, notre union, pour être devenue indissoluble, n'a pas changé de nature et n'a pas cessé d'être aussi pure et aussi fraternelle qu'elle l'est depuis 13 ans. Vos conseils, cher ami, sont pleins de raison, de justesse et d'amitié. Je les suivrais si j'en étais le maître. Mais ceux qui disposent de moi ne m'en laissent pas le moyen, et à force de vouloir me contraindre à rester en France, ils me mettent dans l'absolue nécessité d'en sortir. S'ils n'avaient voulu que s'assurer de moi et m'empêcher de dévoiler au public leurs manœuvres, j'étais tout résigné sur ce point à leur volonté et déterminé d'acheter à ce prix mon repos, j'aurais fini mes jours dans le lieu qu'ils auraient voulu, sans plus faire aucune tentative pour leur échapper. Mais me tenir captif n'est pas l'objet à quoi ils se bornent, et il ne leur suffit pas même de me diffamer s'ils ne me forcent à me déshonorer moi même en me réduisant à mourir de faim ou à recevoir d'eux ma subsistance. C'est dans cette vue qu'ils me font consumer mon temps et ma bourse à courir de lieu en lieu et d'auberge en auberge sans pouvoir trouver de gîte convenable. C'est dans cette vue qu'ils me suscitent des difficultés, des frais et des embarras à tout et pour tout. Ils ont laissé venir ma compagne. Ils ont senti que c'était un embarras de plus pour moi. Mais elle m'est venue sans mon argent, sans ses hardes, sans passeport, et si nue que hors ce qu'elle porte sur elle, elle n'a pas un seul manteau de lit, ni jupon pour changer. L'habitation des villes m'est interdite. Le travail m'est interdit. Mes finances ne sont pas inépuisables. C'est l'affaire de deux ou trois ans au plus pour manger le tout, sans avoir un liard à laisser à ma femme. C'est là qu'ils m'attendent, pour me forcer à m'endier et à recevoir d'eux mon pain pour le prix de mon déshonneur. Je n'ai d'autre moyen d'éviter cette extrémité que de sortir du royaume où, libre au moins de tout engagement de ma part, je ne porterai que les chaînes de la nécessité sans être encore lié par mon consentement, et je serai pleinement maître de choisir pour subsister les moyens qui me paraîtront les meilleurs et les plus honnêtes. Voilà les principaux motifs de ma résolution. Je ne puis pas ici vous tout dire, mais quoique je sois sûr de n'être exempt d'embûches nulle part, je ne suis pas moins sûr de ne pouvoir plus vivre avec honneur au milieu des fourbes qui m'ont circonvenu dans cette province, et m'étant engagé à ne pas m'établir dans la vôtre, je ne puis manquer à cette promesse sans manquer à mon devoir. Je ne puis, cher ami, vous en dire aujourd'hui davantage. J'ai du monde à dîner, on me presse de finir, mais j'ajouterai seulement que je serais bien aise de savoir au juste à quoi je dois m'attendre pour le sort de mes malles et de mon argent qui se promènent de Paris à Lyon et de Lyon à Paris sans que je sache comment ni pourquoi. Monsieur votre frère m'offre d'y suppléer, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Recevez, chère cousine, pour vous tout entière, vous m'entendez, tous les sentiments des deux cœurs qui n'en font qu'un, surtout pour vous aimer. Avez-vous eu la bonté de faire retirer un jupon qui devait être dans le sac de nuit de la demoiselle Frère Je voudrais bien donner une robe simple et honnête à ma femme. Voudriez-vous bien la choisir pour moi Couleur modeste, cela s'entend. À Monsieur Laliot, à Bourgoin, le 28 novembre 1768. Je ne puis pas mieux vous détromper, monsieur, sur la réserve dont vous me soupçonnez envers vous, qu'en suivant en tout vos idées et vous en confiant l'exécution. Et c'est ce que je fais, je vous jure, avec une confiance dont mon cœur est content et dont le vôtre doit l'être. Voici une lettre pour monsieur le prince de Conti, où je parle comme vous le désirez et comme je pense je n'ai jamais ni désiré ni cru que ma lettre à monsieur l'ambassadeur d'angleterre dût ni pu être un secret pour son altesse ni pour les gens en place mais seulement pour le public et je vous préviens une fois pour toutes que quelque secret que je puisse vous demander sur quoi que ce puisse être il ne regardera jamais monsieur le prince de conti en qui j'ai autant et plus de confiance qu'en moi-même vous m'avez promis que ma lettre lui serait remise en main propre je suppose que ce sera par vous J'y compte et je vous le demande. Vous aurez pu voir que le projet de passer en Angleterre qui me vint en recevant le passeport a été presque aussitôt révoqué que formé. De nouvelles lumières sur ma situation m'ont appris que je me devais de rester en France et j'y resterai. Monsieur m. Davenport m'a fait une réponse très engageante et très honnête. L'ambassadeur ne m'a point répondu. Si j'avais su que le sieur Walpole était auprès de lui, vous jugez bien que je n'aurais pas écrit. Je m'imaginais bonnement que toute l'Angleterre avait conçu pour ce misérable et pour son camarade tout le mépris dont ils sont dignes. J'ai toujours agi d'après la supposition des sentiments de droiture et d'honneur innés dans les cœurs des hommes. Ma foi, pour le coup, je me tiens à quoi, et je ne suppose plus rien. Me voilà de jour en jour plus déplacé parmi eux et plus embarrassé de ma figure. Si c'est leur tort ou le mien, c'est ce que je les laisse décider à leur mode. Ils peuvent continuer à balloter ma pauvre machine à leur gré, mais ils ne m'ôteront pas ma place. Elle n'est pas au milieu d'eux. J'ai été très bien pendant une dizaine de jours. J'étais gai, j'avais bon appétit, j'ai fait à mon herbier de bonnes augmentations. Depuis deux jours, je suis moins bien. J'ai de la fièvre, un grand mal de tête, que les échecs où j'ai joué hier ont augmenté. Je les aime et il faut que je les quitte. Mes plantes ne m'amusent plus. Je ne fais que chanter les strophes du tasse. Il est étonnant quel charme je trouve dans ce chant avec ma pauvre voix cassée et déjà tremblotante. Je me mis hier tout en larmes, sans presque m'en apercevoir, en chantant l'histoire l'Inde et de Sophronie. Si j'avais une pauvre petite épinette pour soutenir un peu ma voix faiblissante, je chanterais du matin jusqu'au soir. Il est impossible à ma mauvaise tête de renoncer aux châteaux en Espagne. Le foin de la cour du château de Lavagnac, une épinette et mon tasse, voilà celui qui m'occupe aujourd'hui malgré moi. Bonjour, monsieur. Ma femme vous salue de tout son cœur, j'en fais de même. Nous vous aimons tous deux bien sincèrement. À monsieur Tissot, professeur en médecine à Lausanne, à Bourgoin, janvier 1769. Depuis que nous nous sommes vus, monsieur, la gloire des grands talents et de la vertu a pris pour vous un nouveau lustre et je vois avec la plus vive joie, par la justice que les hommes vous rendent, qu'ils ne sont pas iniques en tout. Traité fort différemment, j'ai été bien défiguré aux yeux du public, mais non pas aux vôtres, j'en suis très sûr. Ils sont faits pour percer le voile illusoire que le temps seul peut lever pour le vulgaire. Je suis le même, vous êtes le même, et j'ai trop éprouvé vos bontés pour ne pas vous écrire avec la même confiance que lorsque j'étais votre voisin. Je veux, monsieur, vous décrire mon état présent, comme il ne me paraît pas ordinaire, j'aime à croire que vous en pourrez peut-être tirer pour votre art quelqu'une de ces observations utiles que vous savez si bien mettre à profit, non pas pour vos semblables, car malheureusement vous n'en avez guère, mais pour le bien de l'humanité. J'habite ici un pays marécageux, sujet aux fièvres où peu de gens vieillissent et qui généralement passe pour malsain. J'y ai passé cinq mois. Les trois premiers en automne dans la plus mauvaise saison de l'année sans cependant m'en trouver incommodé au contraire je paraissais engraissé et mes habits rétrécis me faisaient juger que j'avais pris du ventre il y a deux mois environ que je me préparais à en sortir et il y a environ deux mois que mon état change à vue d'œil je marquerai presque à un jour près l'époque de ce changement. Il a commencé par une abondance de vent par haut et bas d'une force et d'une puanteur extraordinaires. La putréfaction la plus abominable ne produit pas de pires exhalaisons. Dans le même temps, mon estomac s'est gonflé considérablement et même sensiblement. On voit l'enflure au dehors, on la sent, elle garnit tout le défaut des côtes, surtout du côté du foie où elle est plus considérable que de l'autre. Cette enflure qui recouvre le creux de l'estomac et les fausses côtes est molle, mais non œdémateuse. Elle s'étend sur toute la région voisine. Elle est non pas douloureuse, mais si inquiétante que je ne puis endurer le contact des vêtements ni du linge en cette partie. Il s'y joint une inquiétude interne, de l'oppression et surtout la nuit. Je ne puis écrire sans m'arrêter et me redresser à chaque instant. Quand je veux me baisser, j'étouffe, et il m'aide de toute impossibilité de mettre mes souliers. Les vents sont moins abondants, moins puants, mais plus contraints. La nécessité et la difficulté de les exhaler me font faire pour cela beaucoup d'efforts, souvent inutiles, et ces efforts me fatiguent beaucoup. Quand je mange, la déglutition se fait avec quelques peines, et comme si l'entrée de l'estomac était trop étroite, je sens les morceaux faire un peu d'effort pour passer. À propos de manger, je dois vous prévenir, monsieur, que, quoique j'aime la table, j'y suis toujours assez sobre, que je n'y ai fait aucun excès et n'ai gagné aucune apparence d'indigestion depuis que je suis à Bourgoin. J'oubliais de vous dire qu'il se joint à mon mal de petites palpitations, que mon inquiétude d'estomac va quelquefois jusqu'à des élans douloureux mais courts, que j'ai toutes les nuits de la fièvre, mal à la tête, des bourdonnements d'oreilles qui, non plus que la fièvre ne me sont pas nouveaux, mais deviennent plus forts et plus permanents. J'en dis autant de l'insomnie, ayant presque entièrement perdu le sommeil depuis plus de trente ans. Mais à présent je perds aussi le repos, ne pouvant garder la nuit aucune attitude assez longtemps pour m'y tranquilliser. Ma pauvre femme m'a persécuté pour prendre des clistères. Par complaisance, j'en ai pris trois jours de suite. Le premier ne me fit aucun mal et fit peu d'effet. Le second jour, je fus plus tourmenté. Le troisième, je souffris de grandes coliques. J'ai cessé d'en prendre. Cependant, mon état fait des progrès qui m'annoncent ce qu'il doit faire encore, et que mon espoir n'est pas d'arrêter, quoique je ne doute point, monsieur, que vous ne fissiez cette cure si les hommes la pouvaient faire. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est de la cause de mon mal sur laquelle je m'abstiendrai de vous dire mon opinion parce qu'elle est de trop peu de poids et qu'il faudrait, pour marquer sur quoi je la fonde, entrer dans des détails qui me mèneraient trop loin. Je dirais seulement que ma guérison, fût-elle à espérer, serait peu à désirer, et que le succès même en serait inutile, parce que la cause en renaîtrait toujours. Mettez, monsieur, cette maladie dans vos registres si vous jugez qu'elle en vaille la peine et puisse-t-elle vous fournir quelques réflexions constructives, soit pour la conservation de cette courte et misérable vie humaine, soit pour apprendre de plus en plus aux hommes à ne l'estimer que ce qu'elle vaut. Pour moi, je ne verrai pas sans consolation approcher la fin de la mienne si cette occasion peut m'attirer de votre part quelques témoignages de souvenirs et d'amitié. Renou. À Madame Rousseau, Monquin, ce samedi 12 août 1769. Depuis vingt-six ans, ma chère amie, que notre union dure, je n'ai cherché mon bonheur que dans le vôtre. Je ne me suis occupé qu'à tâcher de vous rendre heureuse. Et vous avez vu par ce que j'ai fait en dernier lieu, sans m'y être engagé jamais, que votre honneur et votre bonheur ne m'étaient pas moins chers l'un que l'autre. Je m'aperçois avec douleur. Que le succès ne répond pas à mes soins, et qu'ils ne vous sont pas aussi doux à recevoir qu'ils me l'aident de vous les rendre. Je sais que les sentiments de droiture et d'honneur avec lesquels vous êtes nés ne s'altéreront jamais en vous, mais quant à ceux de tendresse et d'attachement qui jadis étaient réciproques, je sens qu'ils n'existent plus que de mon côté. Ma chère amie, non seulement vous avez cessé de vous plaire avec moi, mais il faut que vous preniez beaucoup sur vous pour y rester quelques moments par complaisance. Vous êtes à votre aise avec tout le monde, hors avec moi. Tous ceux qui vous entourent sont dans vos secrets, excepté moi, et votre seul véritable ami est le seul exclu de votre confidence. Je ne vous parle point de beaucoup d'autres choses. Il faut prendre nos amis avec leurs défauts, et je dois vous passer les vôtres comme vous me passez les miens. Si vous étiez heureuse avec moi, je serais content, mais je vois clairement que vous ne l'êtes pas, et voilà ce qui me déchire. Si je pouvais faire mieux pour y contribuer, je le ferais et je me tairais, mais cela n'est pas possible. Je n'ai rien omis de ce que j'ai cru pouvoir contribuer à votre félicité. Je ne saurais faire davantage, quelque ardent désir que j'en ai. En nous unissant, j'ai fait mes conditions, vous y avez consenti, je les ai remplies. Il n'y avait qu'un tendre attachement de votre part qui pût m'engager à les passer et à n'écouter que notre amour au péril de ma vie et de ma santé. Convenez, ma chère amie, que vous éloigner de moi n'est pas le moyen de me rapprocher de vous. C'était pourtant mon intention, je vous le jure. Mais votre refroidissement m'a retenu et des agaceries ne suffisent pas pour m'attirer lorsque le cœur me repousse. En ce moment même où je vous écris, navré de détresse et d'affliction, je n'ai pas de désir plus vif et plus vrai que celui de finir mes jours avec vous dans l'union la plus parfaite et de n'avoir plus qu'un lit lorsque nous n'aurons plus qu'une âme. Rien ne plaît, rien n'agrée de la part de quelqu'un qu'on n'aime pas. Voilà pourquoi, de quelque façon que je m'y prenne, tous mes soins, tous mes efforts auprès de vous sont insuffisants. Le cœur, ma chère amie, ne se commande pas et ce mal est sans remède. Cependant... Quelque passion que j'ai de vous voir heureuse à quelque prix que ce soit, je n'aurais jamais songé à m'éloigner de vous pour cela si vous n'eussiez été la première à m'en faire la proposition. Je sais bien qu'il ne faut pas donner trop de poids à ce qui se dit dans la chaleur d'une querelle, mais vous êtes revenu trop souvent à cette idée pour qu'elle n'ait pas fait sur vous quelque impression. Vous connaissez mon sort, il est tel qu'on n'oserait pas même le décrire, parce qu'on y saurait ajouter foi. Je n'avais, cher ami, qu'une seule consolation, mais bien douce, c'était d'épancher mon cœur dans le tien. Quand j'avais parlé de mes peines avec toi, elles étaient soulagées, et quand tu m'avais plaint, je ne me trouvais plus à plaindre. Il est sûr que ne trouvant plus que des cœurs fermés ou faux, toute ma ressource, toute ma confiance est en toi seule. Le mien ne peut vivre sans s'épancher, et ne peut s'épancher qu'avec toi. Il est sûr que si tu me manques et que je sois réduit à vivre absolument seul, cela m'est impossible, et je suis un homme mort. Mais je mourrais cent fois plus cruellement encore si nous continuions de vivre ensemble en mes et que la confiance et l'amitié s'éteignissent entre nous. Ah, mon enfant, à Dieu ne plaise que je sois réservé à ce comble de misère. Il vaut mieux cent fois cesser de se voir, s'aimer encore et se regretter quelquefois. Quelque sacrifice qu'il faille de ma part pour te rendre heureuse, sois-le, à quelque prix que ce soit, et je suis content. Je te conjure donc, ma chère femme, de bien rentrer en toi-même, de bien sonder ton cœur, et de bien examiner s'il ne serait pas mieux pour l'un et pour l'autre, que tu suivisses ton projet de te mettre en pension dans une communauté pour t'épargner les désagréments de mon humeur, et, et à moi ceux de ta froideur, car dans l'état présent des choses, il est impossible que nous trouvions notre bonheur l'un avec l'autre. Je ne puis rien changer en moi, et j'ai peur que tu ne puisses rien changer en toi non plus. Je te laisse parfaitement libre de choisir ton asile et d'en changer si tôt que cela te conviendra. Tu n'y manqueras de rien. J'aurai soin de toi plus que de moi-même, et sitôt que nos cœurs nous feront mieux sentir combien nous étions nés l'un pour l'autre, et le vrai besoin de nous réunir, nous le ferons, pour vivre en paix et nous rendre heureux mutuellement jusqu'au tombeau. Je n'endurerai pas l'idée d'une séparation éternelle, je n'en veux qu'une qui nous serve à tous deux de leçon, je ne l'exige point même, je ne l'impose point, je crains seulement qu'elle ne soit devenue nécessaire. Je t'en laisse le juger et je m'en rapporte à ta décision. La seule chose que j'exige, si nous en venons là, c'est que le parti que tu jugeras à propos de prendre se prenne de concert entre nous. Je te promets de me prêter là-dessus en tout à ta volonté, autant qu'elle sera raisonnable et juste, sans humeur de ma part et sans chicane. Mais, Quant au parti que tu voulais prendre dans ta colère de me quitter et de t'éclipser sans que je m'en mêlasse et sans que je susse même où tu voulais aller, je n'y consentirais de ma vie, parce qu'il serait honteux et déshonorant pour l'un et pour l'autre et contraire à tous nos engagements. Je vous laisse le temps de bien peser toute chose. Réfléchissez pendant mon absence au sujet de cette lettre, pensez à ce que vous vous devez, à ce que vous me devez, et à ce que nous sommes depuis longtemps l'un à l'autre, et à ce que nous devons être jusqu'à la fin de nos jours, dont la plus grande et la plus belle partie est passée, et dont il ne nous reste que ce qu'il faut pour couronner une vie infortunée, mais innocente, honnête et vertueuse, par une fin qui l'honore et nous assure un bonheur durable. Nous avons des fautes à pleurer et à expier, mais, grâce au ciel, nous n'avons pas à nous reprocher ni noirceur ni crime. N'effaçons pas par l'imprudence de nos derniers jours la douceur et la pureté de ceux que nous avons passés ensemble. Je ne vais pas faire un voyage bien long ni bien périlleux, Cependant, la nature dispose de nous au moment que nous y pensons le moins. Vous connaissez trop mes vrais sentiments pour craindre qu'à quelques degrés que mes malheurs puissent aller, je sois homme à disposer jamais de ma vie, avant que le temps que la nature ou les hommes auront marqué. Si quelque accident doit terminer ma carrière, soyez bien sûr, quoi qu'on en puisse dire, que ma volonté n'y aura pas eu la moindre part. J'espère me retrouver en bonne santé dans vos bras, d'ici à quinze jours au plus tard. Mais, s'il en était autrement, et que nous n'eussions pas le bonheur de nous revoir, souvenez-vous en pareil cas de l'homme dont vous êtes la veuve, et d'honorer sa mémoire en vous honorant. Tirez-vous d'ici le plus tôt que vous pourrez, qu'aucun moine ne se mêle de vous ni de vos affaires, en quelque façon que ce soit. Je ne vous dis point ceci par jalousie, et je suis bien convaincu qu'ils n'en veulent point à votre personne, mais n'importe profitez de cet avis, ou soyez sûr de n'attirer que déshonneur et calamité sur le reste de votre vie. Adressez-vous à M. de Saint-Germain pour sortir d'ici. Tâchez d'endurer l'air méprisant de sa femme par la certitude que vous ne l'avez pas mérité. Cherchez à Paris, à Orléans ou à Blois une communauté qui vous convienne, et tâchez d'y vivre plutôt que seul dans une chambre. Ne comptez sur aucun ami, vous n'en avez point ni moi non plus, soyez-en sûr, mais comptez sur les honnêtes gens et soyez sûr que la bonté du cœur et l'équité d'un honnête homme vaut cent fois mieux que l'amitié d'un coquin. C'est à ce titre d'honnête homme que vous pouvez donner votre confiance au seul homme de l'être que vous savez que je tiens pour tel. Ce n'est pas un ami chaud, mais c'est un homme droit qui ne vous trompera pas et qui n'insultera pas ma mémoire parce qu'il m'a bien connu et qu'il est juste. Mais il ne se compromettra pas, et je ne désire pas qu'il se compromette. Laissez tranquillement exécuter les complots faits contre votre mari, ne vous tourmentez point à justifier sa mémoire outragée, contentez-vous de rendre honneur à la vérité dans l'occasion, et laissez la Providence et le temps faire leur œuvre. Cette œuvre se fera tôt ou tard. Ne vous rapprochez plus des grands, n'acceptez aucune de leurs offres, encore moins de celles des gens de lettres. J'exclus nommément toutes les femmes qui se sont dites mes amies. J'excepte madame Dupin et madame de Chenonceau. L'une et l'autre sont sûres à mon égard et incapables de trahison. Parlez-leur quelquefois de mes sentiments pour elles. Ils vous sont connus. Vous aurez assez de quoi vivre indépendante avec les secours que monsieur Dupéroux a dessein de vous donner et qu'il vous doit puisqu'il en a reçu l'argent. Si vous aimez mieux vivre seul chez vous que chez les religieuses, vous le pouvez. Mais ne vous laissez pas subjuguer, ne vous livrez pas à vos voisines, et ne vous fiez pas aux gens avant de les connaître. Je, je finis ma lettre si à la hâte que je ne sais plus ce que je dis. Adieu, cher ami de mon cœur, à vous revoir, et si nous ne nous revoyons pas, souvenez-vous toujours du seul ami véritable que vous ayez eu et que vous aurez jamais. Je ne me signerai pas renou, puisque ce nom fut fatal à votre tendresse, mais... Pour ce moment, j'en veux reprendre un que votre cœur ne saurait oublier. À Madame Bois de la Tour, née Roguin, à Lyon, à Monquin le 19 septembre 1769. Si je ne m'étais pas foulé la main par une chute, ma chère amie, je vous aurais répondu sur le champ pour vous tranquilliser sur la morsure de mon chien qui ne pouvait rien avoir de sinistre, vu que ce n'était qu'une jalousie de caresse et de préférence qui lui avait attiré cette morsure, ce qui ne ressemble point à celles qui ont du danger. Il est parfaitement guéri, de même que grâce au ciel un de nos messieurs qui fut mordu lui-même à la jambe par un autre chien. Vous ne doutez pas, chère amie, du vif et vrai désir que j'ai de me rapprocher de vous. Mais les premiers froids dont je sens vivement l'atteinte me tiennent en crainte et la saison des voyages est déjà passée pour moi. Je vous avoue cependant que le souvenir de l'hiver dernier me tient en peine sur celui-ci passé tout entier dans la solitude. L'été, la promenade et l'herborisation m'amusent et me suffisent. Mais l'hiver, la vie sédentaire et le défaut d'amusement prennent sur ma santé et même sur mon humeur. J'avais eu toujours un instrument de musique qui m'était très utile. J'ai cruellement senti le défaut de cette ressource les deux hivers précédents. N'y aurait-il point moyen, cher ami, de me procurer celui-ci? J'ai pensé que peut-être M. Léonis voudrait bien, à votre prière, me procurer quelque épinette à louer pour six mois. Il me rendrait un service plus essentiel qu'il ne paraît s'il voulait bien se donner cette peine. Et je lui en serais sensiblement obligé. « Je ne voudrais pas une patraque. Je voudrais une bonne épinette bien en état, et tout ce qu'il faudrait, cordes, plumes, marteaux, écarlates, pour accommoder ici ce qui se pourrait déranger. Je m'imagine que le transport serait un peu difficile pour qu'elle ne se dérangeât pas beaucoup, et je ne vois pas d'autre expédient que de la faire porter à dos d'homme. » Si l'on pouvait trouver où vous êtes un homme attentif et posé qui la ménagea en route, je vous serais très obligé de faire avec lui le marché et de me donner avis par lui de ce qu'il faut que je lui paye. Si vous ne trouvez pas aisément le porteur qu'il nous faut, j'en peux envoyer un d'ici. L'épinette ne se trouvera peut-être pas aisément. En ce cas pourrais-je avoir du moins un violoncelle qui fut bon, tout monté, des cordes de rechange et de la colophane. Comme cet instrument craint moins le transport, on pourrait l'envoyer par le carrosse, au moins s'il avait un étui, et l'adresser à Bourgoin chez M. Latour Perruquier. Si le violoncelle à louer ne se trouve pas non plus, j'aimerais encore, et même par préférence, un bon six à cinq cordes, monté dans le bas en corde filée un peu grosse, et toujours à louer pour six mois. Enfin, cher ami, si rien de tout cela ne se trouve, je me rabats pour pis à une flûte à bec, dont je vous prie de me faire l'emplette, car ce n'est pas la peine de la louer. Voilà, je vous l'avoue, des commissions bien importunes pour des dames, mais j'espère que l'importance dont cette ressource peut mettre dans ma situation vous fera passer avec votre indulgence ordinaire par-dessus l'incongruité. La musique est pour moi un vrai remède, et le seul peut-être qui puisse être efficace dans mon état. Pourvu que j'ai un instrument, quel qu'il soit, et un peu de papier réglé, je suis sûr de passer mon temps sans ennui et sans m'affecter beaucoup de quoi que ce puisse être. La botanique est amusante en été, mais en hiver elle ne fait que fatiguer et n'amuse guère. Il ne me faut rien qui me fatigue la mémoire et l'esprit. J'espère qu'en me répondant, vous ne ferez pas comme moi qui ne vous parle ici que de ma triole. Connaissez-vous ce mot je ne vois Que vous me parlerez au long de votre santé, de vous, de votre famille, surtout de Fourvière où je n'ai pas écrit depuis un temps infini. Parlez-moi de tout ce que vous savez qui intéresse les deux solitaires qui comptent ici les jours avec impatience jusqu'à ce qu'ils arrivent à celui de vous embrasser. Adieu, cher ami. Voilà le commissionnaire qui attend ma lettre et qui me la fait finir. Point de six à moins qu'il ne soit bon et à cinq cordes. On m'en a fait venir un de lion qui n'était qu'un vrai chaudron totalement injouable. À Madame Bois de la Tour née Roguin à Lyon. À Monquin le 6 octobre 1769. Je reconnais vos bontés ordinaires, mon excellent ami, dans celles que vous avez eues de vous occuper de mon indiscrète commission. Cependant, comme elle ne laissait pas d'être de quelque importance pour mon état, je me suis fait moins de scrupules de charger de ce soin votre amitié et votre humanité. Le porteur de l'instrument pourra s'adresser à Bourgoin au sieur Latour perruquier sur la place, qui lui indiquera le chemin pour venir ici. Latour, où son frère vient de me raser tous les vendredis et mardi matin, et si le voyage de l'homme pouvait s'ajuster sur ces deux mêmes jours, un des deux Latour pourrait l'amener lui-même. Je vous prie de dire au dit porteur que s'il ménage assez l'instrument en route pour qu'il arrive ici d'accord et en bon état, je lui donnerai trente sols pour boire par-dessus l'accord que vous aurez fait. Je regarde cette petite précaution comme fort essentielle. Madame Renoux, qui vous baise les mains de tout son cœur, ainsi qu'à la chère cousine, veut que je vous importune encore de deux commissions, ce que je fais avec une confiance aussi inépuisable que votre complaisance, et dans l'espoir que ce seront les dernières. L'une est d'une petite caisse de chandelle des six à la livre et d'une douzaine de livres. « L'autre serait d'un bon bonnet de laine et d'une paire de bas drapés et de gants chauds pour votre pauvre amie qui commence à grelotter terriblement et que les premiers froids rendent bien malingres. « Si vous y pouviez joindre une paire de mitaines de soie pour elle, j'aurais le plaisir de les lui donner pour sa fête qui est le quinze de ce mois. « Les dix envois peuvent se faire par le carrosse à l'adresse du dixieur Latour, perruquier, pour M. Renaud. Vous avez eu la bonté, cher ami, de me faire précédemment plusieurs petites emplettes pour lesquelles je dois avoir un compte ouvert chez vous. Après y avoir ajouté tous les sus dix articles, veuillez s'il vous plaît, en faisant mes salutations à monsieur votre fils, le prier de ma part de vous rembourser le tout sur l'argent qui est entre ses mains. Si vous jugez à propos d'ajouter à ce mémoire le loyer de l'épinette et le paiement du porteur, je n'aurai pas besoin de débourser ici cet argent, sinon je le lui remettrai soit faite à votre volonté, à condition que vous ne prendrez sur rien le bon marché dans votre poche, ce que je ne dois pas supposer parce que cela serait malhonnête. Voici, cher ami, une lettre pour monsieur Dastier que je vous prie de vouloir bien faire affranchir à son exemple, et que je suis obligé de vous adresser pour cela parce que j'ai remarqué qu'on n'a aucun égard aux affranchissements que je fais faire à Bourgoin. Il a eu la bonté de me faire une petite fourniture de café pour laquelle, suivant son compte, je ne lui dois que douze francs. Or, comment lui faire tenir ces douze francs à Carpentras? Voilà mon embarras. S'il y avait moyen de faire ce petit paiement par quelqu'un des correspondants de vos messieurs, je leur en serais extrêmement obligé, et je marque à M. Dastier que je vous en prie. L'embarras que son affranchissement de lettres me force à vous donner, vous dites assez ce que je pense du vôtre, ainsi je ne vous en parlerai pas. De grâce, cher ami, tolérez l'importunité de ces commissions avec autant d'indulgence que vous mettrez d'exactitude à les faire, c'est tout dire. Une des plus grandes rigueurs de ma destinée et de celle que je sens le plus est d'être toujours à charge à mes amis et de leur être toujours inutile. Ceux qui disposent de moi avec autant de barbarie que d'iniquité ont bien choisi dans mon cœur les endroits les plus sensibles pour ne perdre aucun de leurs coups. Je leur suis obligé du moins d'en faire assez pour réveiller mon courage que des traitements moins indignes auraient peut-être laissé dormir. Bonjour, ma chère et bonne amie. J'attends avec empressement le signe de vie de la chère cousine. S'il faisait moins froid, que je fusse moins paresseux, moins malingre, elle ne me préviendrait sûrement pas. Recevez pour vous et pour elle les plus tendres amitiés des deux pauvres ermites. À Madame de Lesser, née Bois de la Tour, rue Pizet, à Lyon. À Monquin, le 3 novembre 1769. Vous ne doutez pas avec quel plaisir, chère cousine, j'apprends toutes les bonnes nouvelles que vous me donnez de tout ce qui vous touche. Aussi ne me presserais-je pas tant de vous le dire si je n'avais à vous donner en même temps les éclaircissements que vous me demandez sur les importunes commissions dont vous ne vous lassez point et qui sont aussitôt faites que dites. Puisque le papier est acheté, je le prendrai. Il ne sera pas de trop et vaudra peut-être mieux pour l'usage que j'en veux faire que celui qu'on m'a envoyé. À l'égard de l'envoi, il faudra le suspendre encore quelque temps jusqu'à ce que je vois si je puis vous envoyer une coquetière en droiture. Si d'ici à quinze jours il ne vous en vient point, vous pourrez, chère cousine, l'adresser par le carrosse ou autre voie à Monsieur Périal, directeur des postes, pour faire passer à Monsieur Renou à Bourgoin. Trois zones et demi de cotonne ne suffisent pas pour deux grands tabliers. Il en faut cinq zones et demie que vous pourrez envoyer en même temps par la même. Madame Renou est grâce au ciel tout à fait rétablie. Tout bien considéré, je crois qu'une attaque de néphrétique et qui n'a pas été la première en sa vie a eu grande part à sa dernière maladie. Le mot d'aider la nature est assurément fort beau. C'est dommage qu'il soit ridicule. Car pour savoir et pouvoir aider la nature, il faudrait connaître à fond sa constitution, sa marche, ses forces, etc. Je me suis aidé quinze ans de tous ces aideurs de nature, et j'étais toujours mourant. En disant l'aider, il la détruisait. Depuis que je lui ai remis le soin d'elle-même, elle a repris courage, j'ai repris des forces, et je me trouve infiniment mieux. Nous avons fait souvent depuis quatorze ans de grandes maladies, tant ma femme que moi. Nous n'avons rien fait que prendre patience, et nous sommes guéris très promptement. Une fois nous mourrons, sans doute. Croyez vous, cousine, que les aideurs de nature empêchent de mourir? Tout ce qu'on gagne avec eux, même en guérissant, c'est de faire des maladies de six mois qui sans eux sont de six jours. Vous avez dans votre famille le sage roguin qui n'aide point la nature et qui s'en trouve, ce me semble, assez bien. Vous m'alléguez la germandrée, en cela, vous avez raison. C'est une inconséquence, mais sans conséquence. Quand on veut savoir guérir, il faut commencer par savoir être malade. Faute de cet art, on a quelquefois besoin d'aide qui drogue l'esprit sans faire ni bien ni mal au corps. Voilà à quoi peut servir quelquefois la germandrée, ou autre bénigne herbe qui fait bien parce qu'elle ne fait rien. Ma femme approche d'un temps critique où les incommodités sont plus fréquentes qu'en d'autres temps je lui ai conseillé la continuation d'un exercice modéré, parce que j'ai remarqué que les paysannes qui en font ne sont presque point malades à ce passage, et que les femmes de ville qui n'en font point le sont quelquefois beaucoup. Si c'est là ce que vous appelez aider la nature, je suis d'accord avec vous, mais à cela près je croirais toujours ne vous en déplaise que l'homme ignorant et présomptueux qui se mêle d'agir contrarie souvent la nature, et que l'homme sensé qui s'en rapporte à elle seule ne la contrarie jamais. Je suis peiné de ce que vous me marquez au sujet de l'état où est arrivée l'épinette. « Ou vous m'avez interprété trop sévèrement, ou je me suis bien mal exprimé. Elle est arrivée, non pas en fort bon état, parce que cela n'était pas possible, mais en assez bon état, et aussi bon qu'il était possible après un pareil transport. Si vous avez grondé le pauvre homme qui l'a porté, je vous prie instamment de le faire revenir, de lui dire que je suis un sot, que je me suis plaint à tort, que réellement j'ai eu lieu d'être content de l'état où l'épinette est arrivée, et de lui donner pour mon compte encore vingt-quatre sols en réparation de l'injustice que je lui ai faite. » D'autant plus qu'au lieu de trente sols, il n'en a demandé que vingt-quatre pour boire, et que je ne lui ai donné que ce qu'il a dit avoir été promis. Ce n'est qu'en se permettant les petites injustices qu'on s'endurcit sur les grandes. Je n'ai point encore acquis cet endurcissement, et je ne veux pas commencer si tard. Je compte, chère cousine, vous envoyer une coquetière, qui partira d'ici bardi et à qui vous pourrez remettre le paquet. Si vous avez maintenant monsieur de l'essert de retour, comme je l'espère, ne m'oubliez pas auprès de lui. Ma femme vous embrasse de tout cœur. Vous connaissez, chère cousine, les sentiments de votre amie. À M. Laliot, à Monquin, le 30 novembre 1769. J'apprends avec plaisir, monsieur, que vous jouissez, en bonne santé et avec agrément, du beau climat que vous habitez, et que vous êtes content à la fois de votre séjour et de votre récolte. Vous avez deviné bien juste que, tandis que l'ardeur du soleil vous forçait encore quelquefois à chercher l'ombre, j'étais réduit à garder mes tisons, et nous avions eu déjà de fortes gelées et des neiges durables longtemps avant la réception de votre lettre. Cela, monsieur, me chagrine en une chose c'est de ne pouvoir plus, pour cette année, exécuter votre petite commission des rosiers à feuilles odorantes, puisqu'ayant depuis longtemps perdu toutes leurs feuilles, il serait à présent impossible à distinguer et difficile même à trouver. Je suis donc forcé de remettre cette recherche à l'année prochaine, et je vous assure que vous me fournissez l'occasion d'une petite arborisation très agréable en songeant que je la fais pour votre jardin. Je vous dois et vous fais monsieur bien des remerciements des lauriers que vous avez eu la bonne intention de m'envoyer pour mon herbier quoique je ne me rappelle point du tout qu'il en ait été question entre nous ils ne laisseront pas de trouver leur place et de me rappeler votre obligeant souvenir aussi longtemps que je resterai possesseur de mon herbier car il pourrait d'un peu changer de maître ainsi que mes livres de plantes dont je cherche à me défaire étant sur le point de quitter totalement la botanique j'ai fait votre commission auprès de madame de Lesser et je ne doute pas que dans sa première lettre elle ne me charge de ses remerciements et salutations pour vous. Elle a eu la bonté de me pourvoir d'une bonne épinette pour cet hiver cet instrument me fait plaisir encore et me donne quelques moments d'amusement mais il ne me fournit plus de nouvelles idées de musique et je me suis vainement efforcé d'en jeter quelqu'une sur le papier rien n'est venu et je sens qu'il me faut renoncer désormais à la composition comme à tout le reste cela n'est pas surprenant bonjour monsieur le beau soleil qu'il fait ici dans ce moment me fait imaginer des promenades délicieuses en cette saison dans le pays où vous êtes. Et si j'y étais aussi, j'aimerais bien aller faire avec vous. Bonjour, de rechef, portez-vous bien, amusez-vous, et donnez-moi quelquefois de vos nouvelles. À Madame Bois de la Tour, né Roguin à Lyon. À Monquin, le 2 janvier 1770. J'attendais, très cher ami, pour vous remercier, et vous et ma chère cousine, de vos cadeaux, le départ de la messagère qui doit vous reporter le panier. Mais elle tarde si longtemps que je m'en ennuie, et je veux au moins vous dire que les confitures me font grand plaisir, et que le vin me fait grand bien. C'est un secours aussi salutaire qu'agréable contre la rigueur de la saison et celle du logement que j'habite, véritable glacière où le plus grand feu ne fait que me retirer d'un côté tandis que je me gèle de l'autre. Je me réchauffe l'estomac et le cœur en buvant de cet excellent vin et pensant à celle qui l'envoie. Mais pour les extrémités, elles sont si glacées qu'il n'y a rien qui les puisse dégeler. J'ai tellement l'onglet aux doigts qu'il m'est impossible d'écrire. Lisez donc dans mon cœur, très chers amis, ce que mes doigts ne peuvent tracer, et croyez que les tendres amitiés et salutations que nous vous envoyons l'un et l'autre ne se ressentent pas des froides impressions de la saison ni du lieu. Cette lettre part trois jours plus tard que la date. À Madame de Berthier, à Monquin, le 17 janvier 1770. Votre lettre, Madame, exigerait une longue réponse, mais je crains que le trouble passager où je suis ne me permette pas de la faire comme il faudrait. Il m'est difficile de m'accoutumer assez aux outrages et à l'imposture, même la plus comique, pour ne pas sentir à chaque fois qu'on les renouvelle, les bouillonnements d'un cœur fier qui s'indigne, précéder le riz moqueur qui doit être ma seule réponse à tout cela. Je crois pourtant avoir gagné beaucoup. J'espère gagner davantage. Et je crois voir le moment assez proche où je me ferai un amusement de suivre dans leurs manœuvres souterraines ces troupes de noirs taupes qui se fatiguent à me jeter de la terre sur les pieds. En attendant, nature pâtit encore un peu, je l'avoue. Mais le mal est court. Bientôt il sera nul. Je viens à vous. J'eus toujours le cœur un peu romanesque et j'ai peur d'être encore mal guéri de ce penchant en vous écrivant. Excusez donc, madame, s'il se mêle un peu de vision à mes idées, et, et s'il s'y mêle aussi un peu de raison, ne la dédaignez pas sous quelque forme et avec quelque cortège qu'elle se présente. Votre correspondance a commencé d'une manière à me la rendre à jamais intéressante un acte de vertu dont je connais bien tout le prix, un besoin de nourriture à votre âme qui me fait présumer de la vigueur pour la digérer, et la santé qui en est la source. Ce vide interne dont vous vous plaignez ne se fait sentir qu'au cœur fait pour être rempli, et les cœurs étroits ne sentent jamais le vide parce qu'ils sont toujours pleins de rien. Il en est au contraire dont la capacité vorace est si grande que les chétifs êtres qui nous entourent ne la peuvent remplir. Si la nature vous a fait le rare et funeste présent d'un cœur trop sensible au besoin d'être heureux, ne cherchez rien au dehors qui lui puisse suffire. Ce n'est que de sa propre substance qu'il doit se nourrir. Madame, tout le bonheur que nous voulons tirer de ce qui nous est étranger est un bonheur faux. Les gens qui ne sont susceptibles d'aucun autre font bien de s'en contenter, mais si vous êtes celle que je suppose, vous ne serez jamais heureuse que par vous-même. N'attendez rien pour cela que de vous. Ce sens moral si rare parmi les hommes, ce sentiment exquis du beau, du vrai, du juste, qui réfléchit toujours sur nous mêmes, tient l'âme de quiconque en est doué dans un ravissement continuel qui est la plus délicieuse des jouissances. La rigueur du sort, la méchanceté des hommes, les maux imprévus, les calamités de toute espèce peuvent l'engourdir pour quelques moments, mais jamais l'éteindre, et presque étouffé sous le fait des noirceurs humaines, quelquefois une explosion subite peut lui rendre son premier éclat. On croit que ce n'est pas à une femme de votre âge qu'il faut dire ces choses là, et moi je crois au contraire que ce n'est qu'à votre âge qu'elles sont utiles, et que le cœur s'y peut ouvrir. Plus tôt il ne saurait les entendre, plus tard, son habitude est déjà prise, il ne saurait les goûter. Comment s'y prendre, me direz-vous Que faire pour cultiver et développer ce sens moral Voilà madame à quoi j'en voulais venir. Le goût de la vertu ne se prend point par des préceptes. Il est l'effet d'une vie simple et saine. On parvient bientôt à aimer ce qu'on fait quand on ne fait que ce qui est bien. Mais pour prendre cette habitude qu'on ne commence à goûter qu'après l'avoir prise, il faut un motif. Je vous en offre un que votre état me suggère. Nourrissez votre enfant. J'entends les clameurs, les objections, tout haut, les embarras, point de lait, un mari qu'on importune, tout bas, une femme qui se gêne, l'ennui de la vie domestique, les soins ignobles, l'abstinence des plaisirs. Des plaisirs? Je vous en promets, et qui rempliront vraiment votre âme. Ce n'est point par des plaisirs entassés qu'on est heureux, mais par un état permanent qui n'est point composé d'actes distincts. Si le bonheur n'entre, pour ainsi dire, en dissolution dans notre âme, s'il ne fait que la toucher, l'effleurer par quelques points, il n'est qu'apparent, il n'est rien pour elle. L'habitude la plus douce qui puisse exister est celle de la vie domestique qui nous tient plus près de nous qu'aucune autre. Rien ne s'identifie plus fortement, plus constamment avec nous que notre famille et nos enfants. Les sentiments que nous acquérons ou que nous renforçons dans ce commerce intime sont les plus vrais, les plus durables, les plus solides qui puissent nous attacher aux êtres périssables, puisque la mort seule peut les éteindre, au lieu que l'amour et l'amitié vivent rarement autant que nous. Ils sont aussi les plus purs, puisqu'ils tiennent de plus près à la nature, à l'ordre, et, par leur seule force, nous éloignent du vice et des goûts dépravés. J'ai beau chercher où l'on peut trouver le vrai bonheur s'il en est sur la terre. Ma raison ne me le montre que là. Les comtesses ne vont pas d'ordinaire l'y chercher, je le sais. Elles ne se font pas nourrices et gouvernantes. Mais il faut aussi qu'elles sachent se passer d'être heureuses. Il faut que, substituant leur bruyant plaisir au vrai bonheur, elles usent leur vie dans un travail de forçat pour échapper à l'ennui qui les étouffe aussitôt qu'elles respirent. Et il faut que celles que la nature doit de ce divin sens moral, qui charme quand on s'y livre, et qui pèse quand on l'élude, se résolvent à sentir incessamment gémir et soupirer leur cœur, tandis que leur sens s'amuse. Mais moi qui parle de famille, d'enfants, Madame, plaignez ceux qu'un sort de fer prive d'un pareil bonheur, Plaignez-les s'ils ne sont que malheureux. Plaignez-les beaucoup s'ils sont coupables. Pour moi, jamais on ne me verra prévaricateur de la vérité plier dans mes égarements mes maximes à ma conduite. Jamais on ne me verra falsifier les saintes lois de la nature et du devoir pour exténuer mes fautes. J'aime mieux les expier que de les excuser. Quand ma raison me dit que j'ai fait dans ma situation ce que j'ai dû faire, je l'en crois moins que mon cœur qui gémit et qui la dément. Condamnez moi donc, madame, mais écoutez moi, vous trouverez un homme ami de la vérité jusque dans ses fautes, et qui ne craint point d'en rappeler lui même le souvenir lorsqu'il en peut résulter quelque bien. Néanmoins je rends grâce au ciel de n'avoir abreuvé que moi des amertumes de ma vie et d'en avoir garanti mes enfants. J'aime mieux qu'ils vivent dans un état obscur, sans me connaître, que de les voir dans mes malheurs bassement nourris par la traîtresse générosité de mes ennemis, ardents à les instruire, à haïr, et peut-être à trahir leur père, et j'aime mieux cent fois être ce père infortuné qui négligea son devoir par faiblesse et qui pleure sa faute, que d'être l'ami perfide qui trahit la confiance de son ami et divulgue pour le diffamer le secret qu'il a versé dans son sein. Jeune femme, voulez-vous travailler à vous rendre heureuse Commencez d'abord par nourrir votre enfant. Ne mettez pas votre fille dans un couvent, élevez-la vous-même. Votre mari est jeune, il est d'un bon naturel, voilà ce qu'il vous faut. Vous ne me dites point comment il vit avec vous, n'importe, fût-il livré à tous les goûts de son âge et de son temps, vous l'en arracherez par les vôtres sans lui rien dire. Vos enfants vous aideront à le retenir par des liens aussi forts et plus constants que ceux de l'amour. Vous passerez la vie la plus simple, il est vrai, mais aussi la plus douce et la plus heureuse dont j'ai l'idée. Mais encore une fois, si celle d'un ménage bourgeois vous dégoûte, et si l'opinion vous subjugue, guérissez-vous de la soif du bonheur qui vous tourmente, car vous ne l'étancherez jamais. Voilà mes idées. Si elles sont fausses ou ridicules, pardonnez l'erreur à l'intention. Je me trompe peut-être, mais il est sûr que je ne veux pas vous tromper. Bonjour, madame. L'intérêt que vous prenez à moi me touche, et je vous jure que je vous le rends bien. Toutes vos lettres sont ouvertes, la dernière l'a été, celle-ci le sera, rien n'est plus certain. Je ne vous en dirai bien la raison, mais ma lettre ne vous parviendrait pas. Comme ce n'est pas à vous qu'on en veut et que ce ne sont pas vos secrets qu'on y cherche, je ne crois pas que ce que vous pourriez avoir à me dire fût exposé à beaucoup d'indiscrétions. Mais encore faut-il que vous soyez avertis. À Madame de Berthier, Monquin, le 16 mars 1770. Rose, je vous crois, et je vous croirais avec plus de plaisir encore si vous eussiez moins insisté. La vérité ne s'exprime pas toujours avec simplicité, mais quand cela lui arrive, elle brille alors de tout son éclat. Je vais quitter cette habitation. Je sais ce que je veux et dois faire. J'ignore encore ce que je ferai. Je suis entre les mains des hommes. Ces hommes ont leurs raison pour craindre la vérité, et ils n'ignorent pas que je me dois de la mettre en évidence, ou du moins de faire tous mes efforts pour cela. Seul et à leur merci, je ne puis rien. Ils peuvent tout, hors de changer la nature des choses et de faire que la poitrine de Jean-Jacques Rousseau vivant cesse de renfermer le cœur d'un homme de bien. Ignorant dans cette situation en quel lieu je trouverai soit une pierre pour y poser ma tête, soit une terre pour y poser mon corps, je ne puis vous donner aucune adresse assurée. Mais si jamais je retrouve un moment tranquille, c'est un soin que je n'oublierai pas. Rose. Ne m'oubliez pas non plus. Vous m'avez accordé de l'estime sur mes écrits, vous m'en accorderiez encore plus sur ma vie si elle vous était connue, et davantage encore sur mon cœur s'il était ouvert à vos yeux. Il n'en fut jamais un plus tendre, un meilleur, un plus juste. La méchanceté ni la haine n'en approchèrent jamais. J'ai de grands vices, sans doute, mais qui n'ont jamais fait de mal qu'à moi, et tous mes malheurs ne me viennent que de mes vertus. Je n'ai pu, malgré tous mes efforts, percer le mystère affreux des trames dont je suis enlacé. Elles sont si ténébreuses, on me les cache avec tant de soin que je n'en aperçois que la noirceur. Mais les maximes communes que vous m'alléguez sur la calomnie et l'imposture ne sauraient convenir à celle-là. Et les frivoles clameurs de la calomnie sont bien différentes dans leurs effets des complots tramés et concertés durant de longues années dans un profond silence et dont les développements successifs dirigés par la ruse, opérés par la puissance, se font lentement, sourdement et avec méthode. Ma situation est unique. Mon cas est inouï depuis que le monde existe. Selon toutes les règles de la prévoyance humaine, je dois succomber, et toutes les mesures sont tellement prises qu'il n'y a qu'un miracle de la Providence qui puisse confondre les imposteurs. Pourtant, une certaine confiance soutient encore mon courage. Jeune femme, écoutez-moi, quoi qu'il arrive, et quelque sort qu'on me prépare, quand on vous aura fait l'énumération de mes crimes, quand on vous en aura montré les frappants témoignages, les preuves sans réplique, la démonstration, l'évidence, souvenez-vous des trois mots par lesquels ont finit mes adieux, je suis innocent. Vous approchez d'un terme intéressant pour mon cœur. Je désire d'en savoir l'heureux événement aussitôt qu'il sera possible. Pour cela, si vous n'avez pas avant ce temps-là de mes nouvelles, préparez d'avance un petit billet que vous ferez mettre à la poste aussitôt que vous serez délivré sous une enveloppe à l'adresse suivante à Madame Bois de la Tour, née Roguin à Lyon. 9e partie, la vie cachée. Paris, 1771, 1778. À monsieur Dussault, Paris, ce 4 de janvier 1771. Si monsieur Dussault faisait quelquefois collation sur le bout du banc, pour être au lit à dix heures, je lui proposerais aujourd'hui un petit souper, non d'apicius, mais d'épicure, et tel qu'on en fait guère à Paris. Ce souper, j'y ai pourvu, serait animé d'une bouteille de son vin d'Espagne, surtout de sa présence et de son entretien. S'il consent, je lui demande un petit oui, afin que le plaisir de le voir soit précédé de celui de l'attendre, à moins qu'il n'aime mieux croire que ce soit pour faire d'avance les préparatifs du festin. Les respects de ma femme et les miens à Madame Dussault. Monsieur Bernardin de Saint-Pierre, ce vendredi 3 août 1771. La distraction, monsieur, de la compagnie qui était chez moi à l'arrivée de votre paquet, et la persuasion que c'était en effet des mines étrangères, m'ont empêché de l'ouvrir, et je me suis contenté de vous en remercier à la hâte. En y regardant, j'ai trouvé que c'était du café. Monsieur, nous ne nous sommes jamais vus qu'une fois et vous commencez déjà par les cadeaux. C'est être un peu pressé, ce me semble. Comme je ne suis point en état de faire des cadeaux, mon usage est, pour éviter la gêne des sociétés inégales, de ne point voir les gens qui m'en font. Vous êtes le maître de laisser chez moi le café ou de l'envoyer reprendre. Mais dans le premier cas, trouvez bon que je vous en remercie et que nous en restions là. Je vous prie, monsieur, d'agréer mes très humbles salutations. À Monsieur Linné, Paris le 21 septembre 1771. Recevez avec bonté, monsieur, l'hommage d'un très ignare mais très ailé disciple de vos disciples, qui doit en grande partie à la méditation de vos écrits, la tranquillité dont il jouit au milieu d'une persécution d'autant plus cruelle qu'elle est plus cachée, et qu'elle couvre du masque de la bienveillance et de l'amitié la plus terrible haine que l'enfer excita jamais. Seul avec la nature et vous, je passe dans mes promenades champêtres des heures délicieuses, et je tire un profit plus réel de votre philosophie botanique que de tous les livres de morale. J'apprends avec joie que je ne vous suis pas tout à fait inconnu et que vous voulez bien me destiner quelques-unes de vos productions. Soyez persuadé, monsieur, qu'elles feront ma lecture chérie et que ce plaisir deviendra plus vif encore par celui de le tenir de vous. J'amuse une vieille enfance à faire une petite collection de fruits et de graines. Si parmi vos trésors en ce genre il se trouvait quelque rebut dont vous voulussiez faire un heureux, daignez songer à moi. Je les recevrai même avec reconnaissance, seul retour que je puisse vous offrir, mais que le cœur dont elle part ne rend pas indigne de vous. Adieu, monsieur. Continuez d'ouvrir et d'interpréter aux hommes le livre de la nature. Pour moi, content d'en déchiffrer quelques mots à votre suite dans le feuillet du règne végétal, je vous lis, je vous étudie, je vous médite, je vous honore et je vous aime de tout mon cœur. À Madame de Lesser, à Lyon, à Paris, le 6 décembre 1771. J'ai reçu, chère cousine, le très petit sac de marron que vous m'avez envoyé. Il faut qu'il y ait eu quelques quiproquos dans l'envoi, car celui que j'ai reçu est un très grand sac, d'une pesanteur énorme. En attendant l'explication, je vais toujours alléger le sac d'une partie de son contenu, en en mangeant autant qu'il me sera possible pour ne pas entasser des indigestions. Je reçois vos cadeaux et ceux de votre bonne maman avec le même cœur que vous mettez à leurs envois. Mais il me semble pourtant que s'ils étaient un peu plus proportionnés à la consommation de mon ménage, ils me feraient encore plus de plaisir. Je ne comprends pas, chère cousine, ce que monsieur votre beau-frère a pu vous dire de mon logement pour exciter là-dessus votre commisération mais je puis vous assurer que ce logement, quoique fort petit et fort haut, est fort gai, fort agréable, qu'il paraît charmant à tous ceux qui me viennent voir, et que je n'en ai jamais occupé aucun qui fût plus de mon goût. Loin d'avoir à me plaindre de la manière dont je vis actuellement, j'en bénis le ciel chaque jour davantage. Quand j'aurai cent mille livres de rente, je ne voudrais être ni logé, ni nourri, ni vêtu autrement que je ne suis, et le seul vœu qui me reste à faire à cet égard est d'achever mes jours dans la même situation, sans monter ni descendre. C'est à peu près celle où je suis né et pour laquelle j'étais fait. On ne pourrait m'en assigner aucune autre dans laquelle je ne vécusse beaucoup moins heureux. Je finis ma lettre en hâte, me réservant de vous écrire plus à mon aise quand j'aurai moins d'embarras. Recevez les tendres salutations de deux cœurs qui vous aiment et faites-les aussi à tout ce qui vous est cher. À Madame la Comtesse d'Egmont, vers 1771 agréé madame l'hommage d'une vieille muse que le désir de vous plaire pouvait seul rajeunir dans ces chants quoique tardifs il devrait se trouver encore quelques sons touchants et tendres modulés par votre ordre ils vous étaient consacrés j'en aurais voulu faire des hymnes à madame la marquise de Créqui, 4 août 1773 je vous entends, madame. Les ouvriers de ténèbres sont arrivés jusqu'à vous. On vous a prouvé généreusement que Jean-Jacques était un méchant. Ce n'est pas à lui que l'on a prouvé cela, c'est à vous, en son absence, à son insu et en grand secret. Ainsi la vérité, escortée de la ruse, de la puissance et de leurs nombreux satellites, se masque, rampe et travaille sous terre, tandis que le mensonge seul, délaissé, trahi, mais intrépide et fier, l'interpelle à grands cris et marche à la face du Soleil. Et cela vous paraît assez naturel pour me juger sans vouloir m'entendre, pour ne pas même daigner rompre ouvertement avec moi, pour me déchirer le cœur à loisir par les anxiétés de l'incertitude. Je veux supposer tous les flambeaux de l'évidence réunis pour me convaincre. Je veux qu'un délateur secret ne soit pas toujours un homme vil, qu'un honnête homme puisse en diffamer un autre à son insu, qu'il soit permis de se cacher de l'accusé vivant et présent pour le juger, sans vouloir ni lui parler ni l'écouter. Quelques hommes, du moins, ont droit d'être acceptés de cette inique règle. Jean-Jacques Rousseau pouvait se flatter dans les trains, et j'aurais cru qu'une amitié de vingt ans avait quelque droit à réclamer dans le cœur de madame de Créqui pour un homme fût-il d'ailleurs coupable, mais qu'elle a recherché et qui du moins n'eut jamais aucun tort avec elle. Pensez-y mieux madame. Je vous en conjure par cet amour de la vérité et de l'équité que j'ai cru voir dans votre âme. Ne vous préparez pas des regrets pour le temps où vous connaîtrez trop tard votre erreur et ne pourrez la réparer. Je vous demande une explication. Faites percer un rayon de lumière dans cet abîme de noirceur où ma raison se perd. Je vous donne ma foi d'homme de bien qui jamais ne fut violé, que tout ce qui sera dit entre nous à ce sujet y restera concentré de ma part et que je n'en ferai jamais aucun usage que de votre consentement. Quoi? Un homme qui passa quarante années de sa vie aimé de tout le monde et sans avoir un seul ennemi est un monstre? L'auteur de l'Héloïse est un scélérat? S'il est quelque malheureux qui le puisse croire, c'est celui-là qui est un monstre, et c'est lui qu'il faut étouffer. Madame, je fais pour vous ce que je n'ai fait pour personne. Je ne cours jamais après ceux qui s'en vont. Les barbares, ils m'ont bien fait souffrir des maux, mais jamais aucun qui m'ait été plus sensible. À Gluck, Paris, le 17 avril 1774. Monsieur le chevalier, je rentre chez moi, ravi de la répétition de votre opéra, Iphigénie. Vous avez réalisé ce que j'ai cru impossible jusqu'aujourd'hui. Veuillez recevoir mes félicitations sincères et mes salutations bien dévouées. À Monsieur le prince Belozelski, à Paris le 27 mai 1775. Je suis vraiment bien aise, monsieur le prince, d'avoir votre estime et votre confiance. Les cœurs droits se sentent et se répondent, et j'ai dit en relisant votre lettre de Genève, peu d'hommes m'en inspireront autant. Vous plaignez mes anciens compatriotes de n'avoir pas pris ma défense, quand leur ministre assassinait, pour ainsi dire, mon âme. Les lâches, je leur pardonne les injustices, c'est à la postérité peut-être à m'en venger. À l'heure qu'il est, je suis plus à plaindre qu'eux. Ils ont perdu, dites-vous, un citoyen qui faisait leur gloire. Mais qu'est-ce que la perte de ce brillant fantôme en comparaison de celle qu'ils m'ont forcé de faire Je pleure quand je pense que je n'ai plus ni parents, ni amis, ni patrie libre et florissante. Ô oh, lac sur les bords duquel j'ai passé les douces heures de mon enfance, charmant paysage où j'ai vu pour la première fois le majestueux et touchant lever du soleil, où j'ai senti les premières émotions du cœur, les premiers élans d'un génie devenu depuis trop impérieux et trop célèbre, hélas, je ne vous verrai plus. Ces clochers qui s'élèvent au milieu des chaînes et des sapins, ces troupeaux bêlants, ces ateliers, ces fabriques, bizarrement épars sur des torrents, dans les précipices, au haut des rochers, ces arbres vénérables, ces sources, ces prairies, ces montagnes qui m'ont vu naître, elles ne me reverront plus. Brûlez cette lettre, je vous supplie, on pourrait encore mal interpréter mes sentiments. Vous me demandez si je copie encore de la musique, et pourquoi non Serait-il honteux de gagner sa vie en travaillant Vous voulez que j'écrive encore Non, je ne le ferai plus. J'ai dit des vérités aux hommes, ils les ont mal prises, je ne dirai plus rien. Vous voulez rire en me demandant des nouvelles de Paris Je ne sors que pour me promener, et toujours du même côté. Quelques beaux esprits me font trop d'honneur en m'envoyant leurs livres, je ne lis plus. « On m'a apporté ces jours-ci un nouvel opéra comique. La musique est de Grétry, que vous aimez tant, et les paroles sont assurément d'un homme d'esprit. Mais c'est encore des grands seigneurs qu'on vient de mettre sur la scène lyrique. Je vous demande pardon, monsieur le prince, mais ces gens-là n'ont pas d'accent, et ce sont de bons paysans qu'il faut. »« Ma femme est bien sensible à votre souvenir. Mes disgrâces ne lui affectent pas moins le cœur qu'à moi, mais ma tête s'affaiblit davantage. » Il ne me reste de vie que pour souffrir, et je n'en ai pas même assez pour sentir vos bontés comme je le dois. Ne m'écrivez donc plus, monsieur le prince. Il ne me serait pas possible de vous répondre une seconde fois. Quand vous serez de retour à Paris, venez me voir et nous parlerons. Agréez, monsieur le prince, je vous prie, les assurances de mon respect. À Madame de Corencey, à Paris, le 9 janvier 1778. J'ai lu, madame, dans le numéro 5 des feuilles que vous avez la bonté de m'envoyer, que l'un des messieurs, vos correspondants, qui se nomme le jardinier d'Auteuil, avait élevé des hirondelles. Je désirerais fort de savoir comment il s'y est pris, et quelle contenance ces hirondelles qu'il a élevées ont faites chez lui pendant l'hiver. Après des peines infinies, j'étais parvenu à mon quin à en faire nicher dans ma chambre. J'ai même eu souvent le plaisir de les voir s'y tenir, les fenêtres fermées, assez tranquilles pour gazouiller, jouer et folâtrer ensemble à leur aise, en attendant qu'il me plût de leur ouvrir, bien sûr que cela ne tarderait pas d'arriver. En effet, je me levais même pour cela tous les jours avant quatre heures. Mais il ne m'est jamais venu dans l'esprit, je l'avoue, de tenter d'élever aucun de leurs petits, persuadé que la chose était non seulement inutile, mais impossible. Je suis charmé d'apprendre qu'elle ne l'est pas, et je serai très obligé pour ma part au jardinier d'Auteuil s'il veut bien communiquer son secret au public. agré, Madame, je vous supplie, mes remerciements et mon respect. À Monsieur le Comte Duprat, à Paris, le 3 février 1778. Vous rallumez, Monsieur, un lumignon presque éteint. Mais il n'y a plus d'huile à la lampe, et le moindre air de vent peut l'éteindre son retour. Autant que je puis désirer quelque chose encore en ce monde, je désire d'aller finir mes jours dans l'asile aimable que vous voulez bien me destiner. Tous les vœux de mon cœur sont pour y être. Le mal est qu'il faut s'y transporter. En ce moment, je suis demi perclu de rhumatisme. Ma femme n'est pas en meilleur état que moi. Vieux! infirme, je sens à chaque instant le découragement qui me gagne. Tout soin, toute peine à prendre, toute fatigue à soutenir effarouche mon indolence. Il faudrait que toutes les choses dont j'ai besoin se rapprochassent, car je ne me sens plus assez de vigueur pour les aller chercher et c'est précisément dans cet état d'anéantissement que, privé de tout service et de toute assistance dans tout ce qui m'entoure, je n'ai plus rien à espérer que de moi. Vous, monsieur le comte, le seul qui ne m'ayez pas délaissé dans ma misère, voyez de grâce ce que votre générosité pourra faire pour me rendre l'activité dont j'ai besoin. Vous m'offrez quelqu'un de votre choix pour veiller à mes effets et prendre des soins dont je suis incapable. Oh, je l'accepte, et il n'en faut pas moins pour m'évertuer un peu car si, par moi même, je puis rassembler deux bonnets de nuit et cinq ou six chemises, ce sera beaucoup. Il n'y a plus que ma femme et mon herbier dans le monde qui puissent me rendre un peu d'activité. Si nous nous embarquons seuls, sous notre propre conduite, au premier embarras, au moindre obstacle, je suis arrêté tout court et je n'y arriverai jamais. J'aime me bercer dans mes châteaux en Espagne de l'idée que vous seriez ici, monsieur, avec monsieur le commandeur, que vous daigneriez aiguillonner un peu ma paresse, que mes petits arrangements s'en feraient plus vite et mieux sous vos yeux, que si vous poussiez l'œuvre de miséricorde jusqu'à permettre ensuite que nous fissions route à la suite de l'un ou de l'autre, et peut-être de tous les deux, alors, comme tout serait aplani, comme tout irait bien, « Mais c'est un château en Espagne, et de tous ceux que j'ai fait en ma vie, je n'en vis jamais réaliser aucun. Dieu veuille qu'il n'en soit pas ainsi de l'espoir d'arriver au vôtre. »« Au reste, je n'ai nul éloignement pour les précautions qui vous paraissent convenables pour éviter trop de sensations. Je n'ai nulle répugnance à aller à la messe. Au contraire, dans quelque religion que ce soit, je me croirai toujours avec mes frères parmi ceux qui s'assemblent pour servir Dieu. » Mais ce n'est pas non plus un devoir que je veuille m'imposer, encore moins de laisser croire dans le pays que je suis catholique. Je désire assurément fort de ne pas scandaliser les hommes, mais je désire encore plus de ne jamais les tromper. Quant au changement de nom, après avoir repris hautement le mien, malgré tout le monde, pour revenir à Paris et l'y avoir porté huit ans, je puis bien maintenant le quitter pour en sortir, et je ne m'y refuse pas. Mais l'expérience du passé m'apprend que c'est une précaution très inutile et même nuisible par l'air de mystère qui s'y joint et que le peuple interprète toujours en mal. Vous déciderez de cela connaissant le pays comme vous faites. Là-dessus, comme sur tout le reste, je m'en remets à votre prudence et à votre amitié. Agréé, monsieur le comte, mes très humbles salutations. Fin des lettres choisies de Jean-Jacques Rousse.